Bonsoir, bonsoir mes chers amis, c'est déjà le dernier soir du programme Espoir nous avons fait, c'est passé extrêmement vite franchement, j'ai pas vu le temps passer avec vous. 20e et dernier épisode. Salut Robin, j'espère que tu es en forme. En forme avec mon petit café. Ah oui, là, voilà. on est parti sur du café. Ah c'est bon. Mais on a aussi d'autres mentions. déjeuner. On va doser un petit peu, ça va être Café, alcool, café, alcool, ouais. on ne sait pas trop par quoi on, on va on finir. On va passer le petit déjeuner ensemble aussi peut-être. Ah ouais. ben bah là, c'est-à-dire qu'on est parti euh... enfin, jusqu'à jusqu après-demain. La surprise c'était surtout hier, on ne savait pas que hier ce serait si long. Moi-même j'avais préparé un gros dossier mais je ne pensais pas que j'allais mettre 5 heures à le sortir de mon corps. Ouais, plus c'est long, plus c'est bon. A... Ah, J'ai reçu beaucoup de commentaires positifs suite à ce clash contre Julien Rochdi et les décroissants, c'est bien amusé. On a fini sur les genoux et je dois vous avouer que c'était une journée difficile pour moi, mais la perspective <laughs> déterminée par une FAQ euh, divertissante et rigolarde avec vous était très agréable. Alors écoutez, le, le, le concept du jour est, est assez simple. On va vous demander, euh, moi je dirais que euh, on a surtout besoin d'encouragement voilà, pour tenir 6 heures en pleine énergie. Euh, des commentaires, des likes, des partages. On dit N'hésitez pas à en faire des caisses. Un vie d'exception, euh, on s'éclate. Daniel répond à toutes les questions, même les plus obscures. Il est fou, il est génial, on l'adore. Voilà. Et évidemment, pour ceux qui le veulent, c'est le dernier soir où nous, nous proposons des, euh, des dons-questions. Donc, si vous voulez à la fois... À continuer de, de, de faire monter cette cagnotte qui, là, maintenant, au moment où on se parle, doit être à pas loin de 30 000 parce que j'ai fait un calcul en milieu d'après-midi, on était à 28, 000, euh, 28 600, je crois, et quelque chose. Et depuis, on a eu d'autres gros dons, donc on ne pas être loin des 30 000, mais bon, ça va être intéressant et on espère être nourri toute la soirée pour vraiment amener la cagnotte au plus haut possible, sachant qu'on on arrêtera, on fermera le, le site sera accessible, mais euh, on. En sorte qu'on ne puisse plus envoyer de dons à partir de demain, je pense demain en, en milieu de soirée. Donc voilà, il vous reste un peu plus de, il vous reste 24 heures si vous voulez nous aider et faire partie de ce grand projet, être un mécène et eh bien de cette, de cette année militante euh, euh, financée via cette cagnotte. Alors, on va, euh, alors comment on va s'articuler l'émission rapidement On va faire un coucou aux donateurs de la veille et aux gros donateurs. Vous allez voir que le ticket d'entrée euh, pour entrer dans le top 10. Incroyable. Il est pas cher, il n'est pas cher. Il y avait 780 euros. Voilà, c'est le, le dixième du classement à envoyer 780 euros. Donc là, je pense qu'on est dans les sommets. C'est magnifique. Je ne sais pas si ce top 10 va, va bouger ce soir. Mais en tout cas, on remercie bien sûr tous ceux qui, euh, bah, qui, qui l'ont nourri. Et les donateurs de la veille. Ensuite, on va faire une brève euh, revue d'actu. Le temps de se chauffer et le temps que les questions de la FAQ arrivent. Et puis ensuite, on va rentrer dans la FAQ. Alors, comme on est des êtres humains et pas des machines, on va quand même faire une pause avec Robin. Euh, disons à, à minuit pour vous voilà donc on pose croquette on, voilà on fait 15 minutes de pause on vous diffuse de la musique on met une image d'entract pour l'entract et on revient 15 minutes après et on continue donc jusqu'à bah, en fait 3h du matin <laughs> ce qui fait 4h chez nous en fait <laughs> c'est difficile bah, ça va on l'a fait une fois on peut le faire deux oui, fois oui, oui, oui. quelque oui. part maintenant on est rodé hein, pour ça il n'y a pas de problème Alors, ça euh, va, le... le petit café il est bon euh, franchement il est bien bien dosé ouais, parfait moi si j'aime bien mmh avec amour franchement excellent franchement excellent c'est ouais, euh, une bonne machine à un café il n'y a rien de mieux alors je parce vous dis que là ça fait cinq minutes donc euh, va falloir tenir <rire> <Mais> <rire> le mec six... qui compte les secondes allez plus six... que 6 <laughs> heures moins cinq minutes voilà ça fait 5h50. déjà ça de bouffait hein. et d'ailleurs je vais vous bouffer encore cinq minutes pour euh, présenter mes excuses aux acheteurs de livres du mois d'octobre parce que au niveau logistique en octobre c'était le bordel bah, la raison pour laquelle c'était le bordel c'est que je fais partie de la chaîne logistique d'Envoi des Livres. Euh, on est une petite entreprise. Et donc, comme j'ai été crevé par les lives, on va dire que j'ai fait un peu moins le, bien le boulot que d'habitude. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, j'avais des commandes. Euh, je, je copiais les commandes à mes expéditeurs. Et puis, en fait, je ratais un ou deux acheteurs. Donc, c'était un peu chaotique. On est en train de, de, de rattraper le, le coup. Vraiment la vraie. Pour ceux qui ont commandé en octobre, euh, ils ont eu une, une, piètre, une piètre qualité de service. D'ordinaire, euh, un livre commandé sur mon, sur mon site arrive en une semaine, dix jours. Parfois, là, c'était plutôt 15 euh, et même un peu plus, surtout pour ceux qui habitent à l'étranger. On vous prie de nous excuser, mais bien sûr, tout livre commandé arrivera. Euh, concernant Garcille Racial, je vous ai dit qu'il y avait une rupture de stock, on a, on a reçu les, euh, les stocks. Donc là, il va commencer à être envoyé à partir de la semaine prochaine. Donc tous ceux qui avaient, parce que ce livre ne cesse de se vendre, euh, tous ceux qui avaient commandé ce livre euh, dans les, les trois dernières semaines ou dans le dernier mois, vont le recevoir incessamment sous peu. Donc euh, encore une fois nos excuses les plus plates. On va essayer d'ailleurs les plus sincères. On va essayer d'améliorer aussi ce, cette chaîne on va dire, logistique pour l'envoi de livres parce que je comprends tout à fait, il y a un désir client d'acheter le livre et de l'avoir le plus rapidement possible. On ne peut pas rivaliser avec Amazon, mais enfin, on, on va essayer de, de faire au mieux. Voilà. Euh, alors les donateurs sur le site danielcoarceau.fr. C'est une FAQ, je répète, hein, pour ceux qui, exemple, qui, qui seraient été absents ces 19 derniers jours et qui voient un live de moi pour la première fois euh, depuis longtemps. Donc là, c'est la FAQ finale, le festival, le bouquet. Voilà. Et si vous voulez euh, y participer en envoyant un don, une remarque, euh, une critique ou autre, le site euh, adéquat, c'est danielconversano.fr. On compte sur vous pour faire péter la baraque pour ce dernier soir alors les donateurs et en particulier le top 10 c'est incroyable c'est phénoménal j'ai pas les mots c'est euh, extraordinaire alors hop, j'arrive parce que moi j'étais pas dessus c'est bon voilà on a en 1 cassé <laughs> un, le mec est abattable un déboulonnable cassé avec 3293 euros on a ensuite. Ah, à 7 euros près, c'était 3300. Quel dommage. Ah, dommage, dommage. Il n'a pas fait un chiffre euro, cassé. On va, on va l'en vouloir pour ça. Non, mais c'est magnifique. On te remercie, bien sûr. Tu es le grand gagnant euh, de ce top 10 des donateurs. En deux, on a Quentin M avec 2500 euros. Magnifique. Époustouflant. En trois, Bertrand qui a dédié son don à la petite Lola. On le remercie pour ça avec 2010 euros. Vétéric, euh, à qui je présente mes excuses. Hier, je l'avais fait sortir du top. Je l'avais. <laughs> je sais pas ce que j'ai foutu, mais en enfin, fait, je l'avais oublié. Donc Vétéric est toujours là avec ses 2000 euros envoyés en une soirée. Deux fois 1000 euros, incroyable. Merci à lui, merci pour son amitié. On a l'équipe, alors ça c'est un nouveau. Il est arrivé cet après-midi et il a posé, boum, dans la caisse, 1009 euros. Il a dédié euh, eh bien, cette, euh, ce don à Alban Gervais, une autre victime eh bien, de la, du remplacement de population en France et de l'insécurité, à qui on pense bien sûr. En 6, on a Loïc de Tokyo avec 1000 euros. Les Flush Brothers, nos deux juifs préférés d'Israël, qui nous ont envoyé ça depuis la maison mère, avec 1000 euros. On a FB qui fait une ré qui revient dans le top à 810 euros. François Raffin avec 800 euros qui est juste en embuscade derrière. Ratchet. Très discret, mais qui a vraiment fait le boulot et qui, est, qui ferme donc ce classement avec une somme plus qu'honorable de 780 euros. Et bien sûr, on remercie les donateurs d'hier qui étaient très nombreux. Hein, le live euh, contre Roche -D, ça a emmené euh, du monde Daniel S, Adrien C, Mehdi, Kevin R, Patrick Zelisco, François Raffin, Nicolas C, Clément B, Jérôme Lombard, Narbou, Jamie Molette, Benjamin pa, Pavillard, Jean-Max, Jean Jade Orbit. Moustakich, Mycroft, TDF, Mathieu Le Brave, Jean Spartan, Jenny Bleu, Hugo P, Adrien Laurent, J Valier, Vito, Gatti, Xavier Sassier, Sophie, Thomas Bébé, Ver, Verum, Ariane, Hugo V, Surhomme Européen, JDMA, Ludo R, Duchassis, Johanna K, Salut Arnaud de Nice, François S, Kélian C, Boris Gâteau, Tost Espana, Sylvain Remise, Junon, FB, Pierre Lucas, Quentin W, Sacha, Raphaël C, Guillaume France, Fred Lumo et David. Belle Boum Amis, chachez-vous. Alors, tu tout, je t'envoie juste un truc à lire sur Telegram, Robin. Par rapport à un donateur, que pas, rien de. Dropper ça. Rien de grave. Euh, droppe. Ouais. Droppe. Mais là, je ne pas. J'essaye. Ok, c'est bon, je te l'envoie. Tic. Et ensuite, on part sur quelques nouvelles. De la France en galère. Alors la première chose, euh, c'est un message que j'ai reçu, donc ça je l'ai envoyé. Donc là, okay. eh ben euh, voilà, ce soir à Paris, place de la République, une foule soutenant le Hamas et ses ignobles exactions en hurlant Allahu Akbar, à quelques mètres du bataillon. Donc là, à... revue, revue d'actu. Euh... Oui, revue. On part <laughs> dans une brève revue d'actu. Bon bah en fait, en gros tout tout va très bien, donc je, évidemment je plaisante, euh, les, les fauves sont lâchés, et encore c'est un mot très joli pour les, les, les ciblés, euh, depuis ce qui s'est passé. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'en fait ce sont eux qui sont responsables de l'attaque en Israël avec ces crimes abominables qu'ils ont commis sur plus de 1000 juifs, mais ils se sentent quand même persécutés. Donc résultat, on va crier dans toute l'Europe, l'Europe, que euh, c -c -c cette inversion accusatoire est insupportable, hein. c'est-à-dire que quoi qu'ils aient fait eux, c'est toujours les autres qui sont responsables ensuite euh, des violences qu'ils subissent en riposte à leur propre violence donc là bah, on peut à la limite c'est même pas la peine de passer le son tu sais quoi voilà tout a été dit puis alors la France c'est vraiment c'est la cour des miracles parce que c'est un, un patriote qui s'appelle Hamin El Katmi qui euh, est angoissé parce que euh, place de la république on entend des Allah Akbar on est défendu par d'autres arabes on est, on est, on est, en fait on est, on est exclu de ce jeu tu vois il n'y a, a plus de il y a, apparemment, il n'y a plus notre mot à dire. C'est les Arabes patriotes contre les Arabes musulmans. On, on a atteint un point de civilisation que je ne comprends plus. voilà Mais en tout cas, Amin El Khatmi, patriote, essayiste, avignonné à Paris, et on, on sent bien le côté avignon d'ailleurs, euh, auteur euh, et défenseur de la France, euh, mais sans Halla, juste Zouzou en fait. Voilà, donc euh, je répète son. Voilà, ce soir à Paris, place de la République, une foule soutenant le Hamas, et sixième misaction en hurlant le Akbar, à quelques mètres du Bataclan, je n'ai plus les mots. Pourquoi ces manifestations ne sont pas interdites Je pose une question à laquelle j'ai une réponse probable, mais voilà, ne pas attiser les tensions, ne pas faire en sorte que les banlieues explosent. Oui, mais combien de temps va durer cette stratégie de la faiblesse Bon, moi, je, je vois une... Le, le Hamas est un mouvement terroriste, il est connu comme tel, on a vu de quoi il était capable. Des gens défilent dans la rue en criant, euh, voilà, leur, ce qui leur crie de guerre, hein, l'Akbar et leur crie de guerre. Hein. C'est un rapport à la religion qui est, qui est moins, euh, moins mystique qu'on ne le croit. Et euh, eh bien eux, ils ont crié, voilà. Et tout ça pour soutenir la Palestine, c'est autorisé en France. Bah c'est tout simplement hallucinant. J'ai pas les mots si ce n'est que dans les grandes villes françaises, pour moi, euh, considérez que vous êtes en partie à l'étranger. C'est-à-dire prenez des précautions comme si vous étiez dans un pays étranger où vous êtes vu comme l'autre. Voilà, c'est vous l'étranger maintenant. Je peux dire que ça et je le dis à la hauteur de, de ce que je pense. Alors regardez, euh, alors depuis quelques jours, je passe ta vie, Robin. Alors c'est une catastrophe parce que, en fait, euh, les, euh, les, les petites racailles ont compris qu'ils pouvaient euh, paralyser le pays en faisant des menaces d'attentats. Mais évidemment, tout est pris au sérieux en ce moment parce qu'il y a un contexte qui est très particulier. Euh, et donc, euh, on a eu Versailles qui a été, été fermé pendant une journée on a eu le Louvre. On a eu des aéroports qui ont été évacués. Et là, bah, on a, euh, voilà, rien que dans le Finistère, pourtant on dit que la Bretagne est préservée, mais alors j'ai l'impression que c'est une vieille idée, menace d'attentat, une cinquantaine d'établissements scolaires ciblés sur la Bretagne, 33 pour le seul département du Finistère. On est vraiment au bout de, 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 de la France de l'Ouest, pourtant. Hein. Donc je lis rapidement, en tout cas le, le premier paragraphe. Une cinquantaine d'établissements scolaires bretons ont été ce 18 octobre, donc ça c'était il y a deux, trois jours, la cible d'alerte à la bombe. Après inspection, les doutes ont été levés, les cours reprendront demain, mais dans un contexte trouble, chacun, j'invite chacun à la vigilance à souligner sur le plateau de France 3 Bretagne le préfet de région Philippe Justin. Euh, voilà, donc je lis juste le premier paragraphe. Une quarantaine d'établissements du Finistère ont été destinataires de mails de menaces d'alerte à la bombe, donc c'est la stratégie de, en fait, de la terreur. Et parmi ces établissements, on dénombre 33 établissements scolaires, écoles, collèges et lycées, indique la préfecture du département. Ces alertes ont été immédiatement prises en compte par les services de l'État les procédures prévues mises en œuvre. Sur la Bretagne, la préfecture de région évalue quant à elle une cinquantaine le nombre d'établissements scolaires ciblés. Alors, Évidemment, c'est normal hein, de prendre au sérieux ce genre de euh, ce genre de menace, puisqu'on ne peut pas se permettre de, cro de, de croire ou de ne pas croire ces gens sur parole. Euh, toutefois, évidemment, je tiens à rappeler euh, l'évidence, c'est que souvent le terrorisme frappe quand on ne s'y attend pas. Ce serait trop facile entre guillemets, et les, terro les terroristes ont, euh, on va dire, cette intelligence-là euh, de taper euh, là et au moment où on ne les attend pas, où on ne les attend plus. Donc moi, je dirais que, euh, bien sûr, il y a quelques jours après euh, par espèce de contamination euh, barbare et sanguinaire il y a des gens qui entrent dans, enfin, des musulmans qui entrent dans l'arène pour eux aussi faire leur djihad mais en général après ça s'apaise et puis ça explose un jour euh, alors qu'on avait repris le cours de nos vies normales c'est ça malheureusement de vivre avec des musulmans on sait jamais quand ils vont exploser donc en fait dans votre tête il faut que ça soit le plan vigiparate en permanence euh, voilà moi je, je vais bientôt aller en france J'y vais pas détendu. J'y vais pour des objectifs précis, pour euh, voir ma mère, pour euh, voir euh, d'autres amis et d'autres membres de la famille, et euh, un peu pour le boulot. Mais euh, vraiment, j'y vais pas euh, la fleur au fusil. Quoi. Je, je sais ce qui peut nous arriver à tous. Et comme je ne suis pas un viriliste, euh, on va dire, euh, idéologique, je sais que ce n'est pas parce que je suis un homme de presque 1m90 qu'il ne m'arrivera rien. Euh, ça, peut, vraiment, euh, ça peut tomber sur tout le monde. Alors ensuite, euh, voilà, bah, encore une fois, attentat à Arras. Euh, donc des suites de l'attentat, évidemment, comme si ça ne suffisait pas, euh, les, euh, les, les lycéens euh, s'en amusent. Un lycéen, on se demande bien de quelle origine, menace de poignarder, ça c'est une photo que je t'envoyais, euh, sa professeur de français pendant l'hommage. Alors euh, voilà, euh, pendant l'hommage, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, pendant l'hommage au professeur qui est mort, euh, le, le, un lycéen me demande... Menace de poignarder, alors c'est que des mots, hein, d'accord, mais vous imaginez le niveau de tension qui peut y avoir euh, dans, la, dans, la tête, euh, dans la tête des professeurs euh, face à cette réalité. Je serais vraiment curieux de voir le, comment la réaction des, euh, des, euh, des professeurs, euh, la réaction électorale, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura un changement électoral ou pas euh, je, me demande, je me demande vraiment. Euh, mais euh, bon. C'est vraiment un contexte. Je n'aimerais pas de professeur en France en ce moment, je vous le dis, je vous le dis très clairement. Et puis alors là, alors là c'est le, le cauchemar absolu. Euh, et, là, et là, on voit que le mot insécurité ne suffit pas pour décrire ce qui est en France. Femme retrouvée égorgée à son domicile à Lille, le suspect interpellé et placé en garde à vue. Alors là, c'est vraiment le, 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 la fin du monde. Enfin, je veux dire, une femme âgée qui a des enfants, qui a des petits-enfants, une française bien sûr, qui a été égorgée par un, par un subsaharien, dont je me souviens plus le, la nationalité, mais, mais, mais peu importe, et euh, donc je, je trouve je, je suis connecté à l'actualité comme vous c'est qu'une impression, j'ai pas fait de stats précises précise, mais j'ai de la mémoire et je trouve que depuis 3 à 6 mois le nombre d'agressions qui sont commises à domicile chez les gens a augmenté, c'est à dire que maintenant vous n'êtes pas seulement en insécurité dans la rue vous êtes en insécurité chez vous euh, donc comment font-ils Est-ce qu'ils font des repérages pour suivre j'en eh ai parlé un peu hier, pour suivre les vieilles dames comme ça euh, et euh, sachant qu'elles sont sans défense, aller les violer. Mais euh, c'est en train de devenir un phénomène euh, d'eux et très inquiétant. Et, et donc, non seulement violer, mais tuer. Euh, donc, en, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change pas grand chose. Mais en particulier, si vous êtes une femme, vous pouvez être euh, intéressé ces monstres-là. Donc, euh, fermez bien vos portes à triple tour. Euh, vérifiez bien quand vous rentrez chez vous que vous n'êtes pas suivi euh, dans les 50 derniers mètres. Euh, voilà, n'hésitez pas à faire une brève inspection. Je sais que c'est pas comme ça qu'on veut vivre, mais on y est contraint. Et vous, soit vous ne pouvez pas faire autrement, soit vous avez fait le choix de rester en France. Donc vous devez vous adapter à cette réalité. Et je dirais par exemple, pour les, pour les gens qui sont, il euh, bon, y a pas mal de, de personnes qui ont, euh, comment dirais-je, qui, euh, qui, qui ont une maison. Bon, là, une maison, vous êtes au rez-de-chaussée, forcément, donc euh, c'est difficile. Vous pouvez installer des caméras de vidéosurveillance euh, Ça, c'est quelque chose qui est dissuasif. Et le, et le noter, enfin, vous vous spécifiez qu'il y a des caméras chez vous, comme ça, ça peut dissuader un cambrioleur, un violeur ou un tueur de venir, ça, franchement, ça peut, le, ça peut les dissuader. Et euh, si euh, vous êtes plutôt locata locataire, dans la mesure du possible, je pense notamment aux jeunes femmes, aux personnes qui ont assez d'énergie pour bouger, bah, essayez d'habiter plutôt dans les hauts étages, parce que tout simplement, ces gens vont la faciliter, et euh, eh bien, quand ils entrent dans les domiciles, euh, eh bien, ils, vont, euh, ils rentrent euh, chez les personnes qui sont au rez-de-chaussée, au premier étage, éventuellement au deuxième, mais rarement, ou alors au tout dernier. Euh, parce que euh, de dernier étage, il part du principe que le voisin du haut n'entendra pas, puisqu'il n'y en a pas. Mais, euh, mais voilà, si dans un immeuble de 7-8 étages, vous êtes au quatrième ou au cinquième, les risques que la personne entre chez vous, à part si elle vous a vraiment repéré de loin, sont plus faibles, mais il faut absolument fermer la porte. Voilà, il faut vraiment fermer la porte. Alors, je, 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 je me sens presque ridicule de dire ça, parce que ce sont des conseils de défense, alors qu'en fait, on devrait être dans une perspective d'attaque, en fait, d'attaque euh, de l'État, poussée par les habitants à faire ce qu'il faut pour, pour, pour calmer définitivement cette racaille et cette saloperie. Mais vu que rien n'est fait, euh, ben on est obligé de penser à des choses, à des gestes de, de survie. Bon, euh, on va essayer de passer à autre chose, même si c'est vraiment euh, douloureux. Enfin, en plus, il y a la photo de la femme qui souriante, qui circule sur Internet. Enfin, c'est des choses qui, 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 qui nous hantent. Mais bon, euh, ça, c'est plutôt, je dirais, positif dans le négatif. Euh, qui on veut alors là, on passe sur le sujet des, des mœurs et des, des sociétales, on va dire. Euh, ben, gros big up, hein, comme, on, comme on dit chez, chez certains jeunes, euh, J. .K. Rowling, l'auteur de, euh, de Harry Potter. Je vais arriver <laughs> si j'ai du mal à rappeler, à m'en rappeler, c'est que je suis pas très lecteur de Harry Potter et j'aime pas spécialement les films, mais je lui reconnais d'avoir créé tout un univers euh, cohérent et puis d'avoir eu un succès monstre, et d'être une femme plutôt élégante d'ailleurs, il faut le dire. Et il y a quelques jours, J.K. Rowling avait, euh, on en avait parlé hein, avec Robin, euh, sur Twitter, elle avait publié une image, enfin euh, elle avait publié une réponse, euh, un tag ou je sais plus quoi, une, euh, euh, des lumières, voilà. une inscription lumineuse qui disait euh, Les hommes trans sont des femmes, et elle, elle avait dit non. Alors évidemment, ça a créé un tollé, ça a été relayé en bien. Euh, euh, pour, pour être félicité, pour être décrié à droite et à gauche. Et là, bah, en fait, euh... <laughs> d'ailleurs, j'adore parce que c'est tu sais, le, le 20 minutes, l'article qui relait ça a, a écrit en roue libre, <laughs> J.K. Rowling ira en prison avec plaisir, plutôt que de genrer correctement les personnes trans. Euh, déjà, euh, génial le titre. Hein, le titre à peine de parti pris de 20 minutes. Hein. En roue libre, depuis 2019, l'autrice tient des propos de plus en plus dégradants et discriminants envers les personnes. <laughs> allez vous faire foutre, sérieusement. Alors, J.K. Rowling a une nouvelle fois tenu des propos transfom sur les réseaux sociaux ce mardi. Depuis 10, 2019, l'autrice de la saga Harry Potter. Qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est moche, ce mot euh, autrice, d'ailleurs Je préfère la mise auteur avec un E, mais autrice, c'est euh, inaudible. Hein. Oh. « Multiplier les sorties humiliantes et discriminantes à l'encontre des personnes transgenres, rapporte le Huffington Post. Cette nouvelle polémique est partie d'une phrase projetée sur le mur du ministère de la Justice au Royaume-Uni, répétée après nous. Les femmes trans sont des femmes. Euh, » J.K. Rowling a partagé la photo sur son compte X, la légendant d'un simple nom. Euh, C'est pas grave. Hein. « euh, Je ferai deux ans de prison avec plaisir », a-t-elle dit. C'est incroyable Choqué, de, euh, de nombreux internautes ont réagi à ce tweet. L'un d'eux rappelant à la romancière qu'elle risquerait peut-être bientôt deux ans de prison en cas d'adoption d'une proposition de loi transformant les propos transphobes en crimes de haine. Je ferai deux ans de prison avec plaisir si l'alternative est l'obligation d'utiliser dans mon langage des termes faux qui tordent la réalité, à rétorqué Chica Rowling. Putain Putain c'est à la fois pas grand chose et l'essentiel. L'autrice a même ajouté qu'elle s'amuserait plus dans un palais de justice que sur n'importe quel tapis rouge qu'elle avait pu fouler par le passé. Putain, mais quel coming out, c'est magnifique. Avec ironie, elle a même demandé à être assignée à la bibliothèque de la prison, précisant que la cuisine lui conviendrait parfaitement aussi. Transphobe, mais soutenu. Un député travailliste maltais a réagi à ses propos sur Instagram. Le discours transphobe qui circule en Grande-Bretagne est inquiétant et atteint des sommets, a-t-il déclaré. On doit désigner les gens transphobes pour ceux qui sont vraiment. Putain, mais euh, le monde est vraiment rempli d'ordures. Depuis 2019, J.K. Rowling multiplie les sorties de plus en plus affirmées contre les personnes transgenres. En 2020, elle avait notamment réagi à un article mentionnant les personnes qui ont leurs règles, expliquant à demi-mot que le terme pour désigner ces personnes-là était les femmes. Une grande partie du casting des films Harry Potter s'est depuis désolidarisé d'elle, mais l'autrice dispose également de soutiens forts comme Elena Boham-Carter. Bah, vous savez, ce qui est génial, c'est quand vous avez des pognons, il y a un moment où vous en avez un petit peu rien à foutre, et ce moment est très appréciable. Voilà, je pense qu'on est nombreux à, à vouloir l'atteindre. Moi, je l'ai atteint de fait parce que j'ai fait de mon rien à branlisme en termes d'opinion bah, ma vie. Mais, euh, mais euh, c'est assez remarquable. Euh, vraiment, c'est, je trouve ça fort enfin, personnellement. Euh, en plus, c'est une femme, donc euh, une femme pourrait être euh, plus dérangée par le, le regard des autres et avoir une mauvaise que les gens aient une mauvaise opinion d'elle. Eh bien non euh, elle a eu la célébrité elle en a mangé euh, ce qu'elle a dit est plutôt clair, c'est à dire maintenant je préfère <laughs> défendre mes idées dans un tribunal que jouer un rôle voilà dans les galas et dans les festivals Eh ben et eh ben ça c'est du courage franchement euh, respect respect alors la dernière info c'est pas vraiment de l'actualité c'est de l'actualité dissidente si on veut hier là c'est un prolongement du clash d'hier mais euh, mais très bref je vous ai parlé donc des, euh, des figures euh, qui étaient euh, des inspirations et c'est le cas hein. Euh, il le dit lui-même, c'est euh, voilà, qu euh, quelqu'un qui relaie souvent et envers qui il a beaucoup d'estime, que Xavier Sassi était un décroissant euh, qui nous parlait du haut euh, eh d'un statut de privilégié euh, qu'il a de par son père. Et on, en a, on, on, en a, on est passé à côté de l'essentiel. C'est que figurez-vous que son papa, le papa, euh, petit papa euh, Sassi, euh, eh bien, euh, c'est en quelque sorte une figure euh, économique de la dissidence, puisqu'il a, a fait partie du projet Anan Assurance. Et là, tout à coup, tout s'éclaire. Euh, en fait, j'ai compris que la sensation que j'avais en lisant. Euh, ça, ça, je ne te l'avais pas dit, je crois, Robin, c'était la petite surprise du jour. La sensation que j'avais en lisant Xavier Sassi, à savoir qu'il avait un logiciel qui Était totalement soralien en fait, ben, c'était pas qu'une sensation. Donc, Anan Assurance Arnaud Sassy remplace Laurent Louis à la tête du projet. Donc, ça, c'est 2015. C'est bien, lui, hein, on a vérifié. Hein. Laurent Louis à la tête de l'Anan Assurance, c'est fini depuis quelques jours déjà. Explication écrite de Laurent Louis sur le site de Debout les Belges. Alors, l'Anan Assurance, c'est vrai que j'ai pas contextualisé. C'était le, le projet qui en fait, c'était un comparateur d'assurance euh, qu'a lancé Dieu donné. Un comparateur d'assurance hors système où euh, en fait, ce qu'il promettait déjà c'était euh, codeur Système, on voit pas trop à quoi ça sert dans le système d'assurance. Mais bon, à la limite, pourquoi pas euh, Mais surtout, il proposait des tarifs avantageux et concurrentiels. Et en fait, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas moins cher que la concurrence. Mais bon, je ne sais pas à quel point c'était un scam. Je ne me suis pas trop posé, euh, posé la question. Mais euh, donc, le, le père de, 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 de Xavier Sassi, qui est, qui est euh, le, le décroissant en chef euh, maintenant de, 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 du Twitter euh, écoloréac, eh bien, en fait, c'est un mec euh, pété de thunes euh, qui reprend des entreprises à droite à gauche et qui a un logiciel euh, anti-occidental euh, national euh, national soralien euh, et qui est totalement en fait dans cette sphère là évidemment c'est pas n'importe qui c'est pas un, un financier euh, euh, enfin, pioché au pifomètre qui va reprendre l'assurance c'est forcément quelqu'un qui soutient en partie ce projet-là pour les raisons, on va dire, politiques ou métapolitiques. Face aux accusations lancées par celui-ci, Dioné répond par l'intermédiaire de Joel Corbeau. Ça ne nous, nous rajeunit pas, ça, Joel Corbeau. <laughs> J'avais oublié qu'il existait, tiens. Et propose un débat vérité ici. Une petite vidéo visible sur Plus pour officialiser l'arrivée du petit nouveau Arnaud Sassi en lieu et place de Laurent Louis. Un petit nouveau que l'on voudrait faire passer pour un escroc alors que si l'on regarde de plus près les en question, il s'agit en réalité de celle d'un courrier mandaté par la Générale Assurance Méditerranéenne, dont M. Sassi était directeur général. Tatati, tatata. Bon, après, euh, le, le site en lui-même, euh, Les Moutons Enragés, euh, je ne dis pas que le site a raison, hein. mais euh, l'information, par contre, est juste. Euh, elle a même été reprise par des médias, on va dire, euh, j'allais dire de confiance, mais des médias dits traditionnels. C'est-à-dire qu'il a bien été, un moment, en tout cas, à la tête de la non-assurance quand ça existait. Donc euh, c'est donc génial. En fait, la, la, la nouvelle droite. Euh, euh, la nouvelle, 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 nouvelle droite euh, éco-réac euh, rêvant de décroissance et de sortie de la société industrielle, bah, en fait, euh, c'est juste la dissidence d'il y a dix ans, quoi. Ou voilà. euh, ces enfants, euh, ou ces rejetons démoniaques. <laughs> J'emploie le mot démoniaque dans un sens absolument non religieux pour vous faire rire. Voilà, donc c'était un petit tour, voilà avant de commencer la, la FAQ euh, tranquillou-bilou. Histoire de finir, il manquait cette, je dirais, ce petit ingrédient à mon chef-d'œuvre. Voilà et je l'ai apporté maintenant avec le, le plus grand plaisir. Euh, maintenant nous allons entrer dans la FAQ, euh, une FAQ confortable de plusieurs heures. Euh, J'espère que les questions seront au niveau. Tâchez de poser des questions pas trop longues, hein les amis, pour ne pas casser le rythme. Et euh, voilà, on le dit avant qu'on se lance dans la réponse aux questions. Like l'émission, partagez-la et le site pour participer à la FAQ et poser une question, c'est Daniel Conversano. .fr ou bien sûr via l'outil YouTube euh, voilà l'outil de paiement YouTube que vous avez sous le chat le petit dollar alors mon petit Romain on en est où on n'a eh bah, aucun don aucune zéro. question ah bah on bah, va bah, au revoir allez suite. ciao <laughs> ah. ça fait du bien de se coucher tôt ça fait du bien euh, bonsoir bonjour Daniel voici 30 euros peu de choses mais un millième tout de même de la somme finale. Bravo pour tout ce contenu, toujours tonique et précurseur, un vrai coach. Je travaille dans un ministère à Paris, oh. plutôt très à gauche. Si tu connais d'autres conversanistes dans le secteur public, je suis preneur bon courage pour la conclusion de cette folle épopée. Y est Boris Gâteau. Il a dit à Paris, c'est ça euh, Un ministère ah oui. à Paris. Oui, oui, oui non, mais parce que Boris, on le connaît, il est intervenu récemment dans une interview privée, enfin dans un live privé. Euh, OK. Ok, j'y penserai. Ben, voilà. D'ailleurs, Boris, qui est un OQI et qui fait partie euh, de Mensa, donc le, le club, il est très intelligent. Oh, oh, oh. C'est samedi en Roumanie, ça hein, gueule ouais, dehors ouais, là. C'est effrayant. <laughs> Tost Espagna, je crois qu'il y a un match de. Peut-être, peut-être. Ouais. <coughs> Tost Espagna, bonjour Daniel, ton avis sur Jean-Marc Morandini Selon moi, encore quelqu'un qui n'a plus sa place à la télévision, surtout sur une chaîne dite de droite. Euh, écoute, je crois qu'il fait référence à un scandale. Il y avait un scandale Morandini il y a quelques années, mais je ne me souviens plus de la teneur de ce scandale. Euh, pédophilie, je crois, Quel ou euh, homo pas autant. homosexuel, machin, truc. Euh... Quelque chose entre les deux. Quelque il y chose a eu entre des les histoires deux. de casting, je crois. Oui, voilà. Bah, Morandini, en fait, il a eu un, 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 une deuxième carrière, hein, parce que pendant longtemps, il était, euh, était blackboulé à, à la télévision. C'est un type que, que j'ai jamais vraiment apprécié. Je veux dire. Euh, pour moi, c'est un type qui, qui, est, qui a l'air faux. Voilà. Après, euh, sur CNews, News, il fait des émissions. Euh, il va un peu dans le sens de la ligne de CNews. News. Donc, de ce point de vue-là, il fait le. Il se soumet à la ligne éditoriale. Euh, voilà. <laughs> il avait vraiment. Par contre, dès qu'il y a eu un soupçon d'antisémitisme, euh, il a coupé la l'antenne à au maître. La qui, qui, qui C'était sur le plateau de Mordini. Non, j'ai pas d'affection particulière, mais pas de haine pour ce mec. Euh... Euh, je sais pas pourquoi avant on disait qu'il était stupide Morandini j'ai pas cette impression je pense que c'est un opportuniste c'est un animateur il, il ne sert aucune cause sinon la sienne euh, rien de spécial à en penser alors ah, on ouais. nous dit Pédo ouais, pour Morandini soupçon, ouais, soupçon ouais. euh, FB nous dit print final pour arriver pour arriver au 30k yes. avec 280 euros Boum. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu as pu rentrer dans le top donateur. Alors, oui, si vous trouvez qu'il y a un décalage entre les donateurs qu'on a cités et euh, en gros le top 10, c'est que juste avant l'émission, j'ai regardé les, 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 les sommes qui arrivaient et j'ai voulu inclure dans le top 10 les gens qui avaient fait des grosses sommes pour les remercier. Donc, en fait, la cagnotte est déjà probablement pas loin de 30 000, hein, mais c'est fabuleux. On vous remercie du fond du cœur. Euh, Sylvain Remise, ouais. bonjour Daniel, que penses-tu de la musique techno? laquelle n'est pas si éloignée de la musique classique, Pff, car certains DJ réalisent même des spectacles avec des orchestres symphoniques. Tr très bonne question qui change un peu, je te, je te remercie pour ça. Écoute, je dirais que, tout simplement, euh, je peux apprécier n'importe quel type de musique euh, qui, on va dire, est réputée même pour être euh, très rythmée, comme, comme, comme la techno, très euh, boum, 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 tant que le rythme est suffisamment calme que ça ne m'expose pas les oreilles et qu'il y a de la mélodie. Donc c'est voilà, c'est pour ça que euh, voilà, je sais pas, je, par exemple, un mec va dire est-ce que tu aimes le death metal Je veux dire pas franchement. Mais si tu me fais écouter du metal où il y a des moments calmes dans le morceau euh, où une ligne mélodique va va, va, va sortir du lot, on va dire et, et peut être retenu par l'oreille et, et par l'âme, si tu me permets le, cette expression, euh, eh bien je vais apprécier. Donc euh, voilà, mais, mais pour être franc, j'en écoute pas souvent, hein, voilà. Moi j'écoute de la techno chill, hein. tu vois. Euh... Bah ça reste de la techno. Hein. C'est vrai, ouais. Bah, ce que tu m'envoies, c'est comment ça s'appelle C'est un peu ça, non Tu m'envoies, toi, des fois. Ce que je t'envoie, bah, c'est de la musique électronique, quoi. C'est plus électro, ouais, ouais. Il... Il... Ouais, ouais. Mais je sais que t'aimes bien Voraclès, ouais. qui fait partie des mecs euh, dont il parle. Ah, un, un DJ qui fait de la musique avec des orchestres. Ah c'est... Ouais, c'est ouais, ça. Ah, excellent, excellent. Ouais, il super. y avait demi je fais attends ah ouais, ouais, mi, mi, au début j'étais <laughs> c'est bien la son qui fait <laughs> ouais c'est ça ah, t'as pas reconnu putain <laughs> t'es nul quoi <laughs> alors merci à Junon M qui donne un petit petit don sans rien dire ouais on nous dit que c'est le métal symphonique effectivement j'aime bien le métal symphonique là là, je trouve que le métal symphonique ça ressemble vraiment à euh, au côté grandiose de la musique classique euh, la techno qui ressemble à la musique classique ouais. j'ai rarement eu cette impression hein. rarement parce qu'il y a un orchestre, mais bon... Mais je <laughs> peux ne pas connaître assez, j'admets mes faiblesses. Ouais, Voraclis, je sais pas comment ça se prononce. Ouais, Affect ouais, très bien. Twin aussi, Careful, c'est un, un connaisseur, c'est bien ça. Les Français sont assez bons d'ailleurs dans ce domaine musical, dans l'électro en général. Bah ouais, on a les daft punk et tout. Ah ouais, ouais, c'est pas... C'est d'être nul, hein. On a notre ami euh, Mojo. <laughs> ouais, ah tiens, regarde Tom dans le chat qui est -ce qu cite euh... Laurent... Laurent Garnier, ouais. ouais. Un, tu m'en as parlé il y a ouais, quelques ouais, ouais, jours. Ouais, je connais bien. Sympathique. Euh, alors, bonsoir Daniel, bravo et merci pour ton travail. On regrette toujours quand il y a du clash entre identitaires, mais Rojdi est tellement surcoté que ça fait quand même du bien de le voir être remis à sa place. Et nous, ouais. Nous dit Pierre. <laughs> J'ai deux questions. Cinéma. Ouais. Remettras-tu un jour en public ou en privé le Vive l'Europe avec le spécialiste du cinéma japonais Je n'avais pas eu le temps de le voir. Et que penses-tu du cinéaste Robert Bresson Tarkovsky l'admirait beaucoup. Bon courage pour la suite. Des belles questions. Écoute, on m'a demandé d'enlever cet entretien, donc. Euh... Donc, je ne le remettrai pas, mais c'est fâcheux parce qu'on a passé beaucoup de temps à le faire et parce qu'il était de qualité. Donc, bon, si peut-être dans cinq ans, j'en sais rien, quand tout sera oublié, euh, ou plus, je ne sais pas. Oui, oui, non, mais on le garde, hein, on l'archive, bien sûr. Je pense qu'en plus, c'était un des tout meilleurs entretiens. Euh, je ne dis pas ça pour te, <laughs> pour te frustrer, mais c'est vrai. Maintenant, alors, Robert Bresson. Euh, oui, j'aime assez, j'aime assez. Euh, il y a ce film avec l'âne qui s'appelle quelque chose comme au hasard Balthazar celui-là j'avais beaucoup aimé euh, un qui s'appelle l'argent également euh, en fait ce que j'aime bien chez Robert Bresson c'est que parfois je trouve qu'on dirait pas un réalisateur français c'est à dire que il y a un tel, un tel soin mis dans la mise en scène euh, parfois de, dans la musique dans le cadrage que ça, ça dénote franchement de, du reste des réalisateurs français qui ont tendance à focaliser plutôt sur le jeu d'acteur sur le message on va dire et moins sur la forme et, et ce que j'aime chez Bresson, c'est que c'est un lecteur assez formel. Après, je trouve que du point de vue, euh, du point de, vue de la réalisation, euh, je pense que Tarkovsky lui, lui est supérieur. Euh, euh, J'ai plus de plaisir à regarder esthétiquement même un film, les films ennuyeux de Tarkovsky. Personnellement, je trouve que Stalker, je trouve que c'est un film qui est parfois très ennuyeux, euh, mais, mais c'est un film aussi qui est magistral euh, dans, dans, dans les mouvements de caméra, dans, dans l'amplitude, euh, dans pas mal de choses. Donc euh, voilà, si je devais faire un classement, je mettrais quand même Tarkovsky au-dessus. Merci Lucas. Merci. Pour son don de 10 euros sans aucun commentaire. Bah, ça fait plaisir. Merci pour cette série, toujours un plaisir, nous dit Quentin. Yes. Quentin W. Ah oui, oui, qui me donne souvent. Merci. Ouais. Merci Ensuite, à lui. Euh, on a Camille. Hey, Camille. Qui est, <laughs> qui est de retour. Alors attends, hop. Et sinon, dit est-il au courant que pour gagner du muscle et être viril, il faut manger plus de calories, donc consommer plus le décroissantisme signifie avoir, signifie avoir tous, le, tout le corps de Thierry Casas-Novas. Oui, oui, oui. Il est très maigre et tout. PS, j'ai bien fait de ne pas acheter son livre au rejet, j'ai failli. C'est vrai que le titre est accrocheur, mais il est fort en marketing. C'est vrai que c'est un, un beau titre. Euh, qui est d'ailleurs très difficile à prononcer en allemand. Untermensch, Untermensch, Untermensch. Ouais, Bah, écoute, je pense que c'est ton meilleur commentaire depuis le début de cette émission. Parce que tu vois, c'est un argument que j'aurais pu donner et que j'ai complètement oublié, mais qui est vrai. Bien sûr, on ne gagne pas en masse musculaire si on mange pas à sa faim. Et c'est pour ça d'ailleurs que même les gens qui travaillaient beaucoup dans les champs ou dans les mines, on va dire, dans le monde d'autrefois, dans le monde européen pré-20e siècle, dans le monde tout court, eh bien, euh, ils étaient sous-nutris. C'est la raison pour laquelle, euh, même si euh, en fait, c'était pas des... Voilà, pour le coup, pas des branleurs à rester à bouffer à la maison toute la journée, mais ils mouraient quand même entre 30 et 50 ans parce que leurs conditions de vie étaient trop, trop terribles. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement omis. Une façon, pourquoi c'est omis Parce que, parce que le, le, le il n'y croit pas lui-même. Pour lui, en fait, c'est en fait, juste une ligne pour se la péter. En fait. Il n'a peut-être même pas conscience de lui-même de ça. Il se, il se ment à lui-même, mais. Mais euh, c'est une ligne qui est absolument inapplicable puisque nous sommes tous des modernes, des produits de notre époque, et on ne voudrait pas faire le quart du tiers des efforts qui étaient faits auparavant dans une société qui était, on va dire, archaïque et qui n'était pas technologique pour euh, bah, tout simplement pour exister. Et, et le, soit l'erreur, et dans ce cas, c'est une forme d'inculture ou de, de manque de compréhension des choses, soit le mensonge, c'est de faire croire qu'on peut faire un entre-deux. Genre, ni vraiment l'homme des cavernes, ni vraiment euh, la société technologique. Ah bah euh, oui, mais alors, euh, mais alors, qui décide de ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas euh, C'est toujours... Des... Franchement, je, je, je vois tellement l'erreur dans laquelle il tombait, parce que c'est le genre d'idée naïve que j'avais, mais quand j'étais adolescent, c'est là où c'est Craignos, je me disais en fait, euh, ben en fait, ce serait super le monde euh, s'il y avait un conseil de sage euh, façon euh, Star Wars voilà le, avec, avec maître yoda voilà pour arbitrer le truc qui détermine ce qui est moral et ce qui ne l'est pas mais en, ce monde un peu quand on, en fait c'est une dérive des gens qui, qui ont de la culture et qui sont intelligents qui se disent mais en fait le monde parfait c'est le monde dominé par des philosophes et des sages mais oui mais, mais, ça, mais ça marche jamais comme ça ça marche jamais comme ça le, le, les gens qui dominent le monde c'est les gens euh, qui prennent le pouvoir parfois en une de techniques euh, machiavéliennes et horribles euh, et c'est eux qui imposent leur truc et, euh, et donc, euh, de, donc en fait c'est de l'idéalisme en fait tout simplement donc c'est donc, de la merde, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, voilà, c'est tout et Sylvain nous dit, as-tu déjà essayé une drogue si oui, qu'en as-tu pensé Alors euh, j'allais dire non mais si en fait une fois euh, mais je suis déjà raconté ça en fait euh, je... <laughs> en fait j'avais je, je, passé une nuit avec une nana tu vois et au petit matin, elle m'avait proposé du Speed. Et euh, j'avais 22 ans. Alors Speed, apparemment, c'est une espèce de sous-cocaïne. Et euh, après, je la regrettais après. Mais, mais on, quand on a 20 ans, quand j'avais peut-être 21 ans, on est con. Et euh, je n'ai pas voulu passer pour un mec euh, qui n'ose pas. Et donc, en fait, euh, j'ai pris un peu de Speed. Voilà, j'ai pris un peu de Speed. Euh. Alors, raconte-nous tout. Bon, euh, alors, au début, je trouvais que ça ne me faisait rien. Il euh, bah, faut dire que voilà, je suis grand. Euh, D'ailleurs, à ce moment-là, c'est une période où j'étais un peu gras. Euh, en fait, je faisais un peu le poids d'aujourd'hui. Après, j'avais maigri et depuis, j'ai repris. T'avais un corps de daron. Ouais, j'avais un corps de daron avant d'être daron, là, c'est vrai. Et, et donc, euh, je me disais, tiens, j'avais pas dû en prendre assez, mais on va, on va en rester là. Et en fait, il y a eu quand même, il euh, y a eu trois effets. C'est que, en fait, euh, je suis resté le matin avec elle, et, et en fait, et ça m'a fait bander fort. Voilà, euh, vraiment, tu vois. Il euh, y avait, un... en fait, je sais pas comment dire, ça m'a créé des palpitations cardiaques et ah, euh, on, on a baisé plusieurs fois tu vois aussi j'étais jeune donc euh, je, entre les on va dire entre les différentes prises ça, ça, ça remontait vite ensuite euh, le soir même j'ai pas dormi mais t'avais toute ta tête ou non j'avais toute ma tête par contre euh, je, je, c est, c est, ça fait pas du tout un effet comme alors j'ai jamais pris de champignons mais tu vois ça fait pas du tout un effet hallucinogène. ok euh, c'est simplement que t'as l'impression d'avoir bu 15 cafés d'un coup tu vois voilà. es aware, tu vois, t es, t es, t es, t es trop ouvert, tu es trop conscient des choses. Et, et le soir, euh, j ai, j ai, vers minuit, j'ai compris que je n'allais pas dormir de la nuit. Tu vois Donc, j'ai fait d'autres trucs, j'ai tout excité. Ah, j'ai eu une espèce d'euphorie, j'avais l'impression que je me trouvais beaucoup plus intelligent. <laughs> D'un coup, j'avais plein d'idées. Je me suis dit, putain, waouh, 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 La descente a dû être dure. Hein. Voilà, et le troisième effet, et ça pour le coup, c'est là où je me suis dit, plus jamais. Jamais. Euh, euh, après, alors, alors que le premier effet était vasoconstricteur, mais ça amenait, tu vois, le du, du sang dans, dans la queue, quoi. En fait, après, ça m'a fait le contraire. Après, pendant 3-4 jours, je n'ai pas bandé du tout. Euh, et quand t'as 21 ans et que t'as pas la gaule du matin, ça fait peur. Mais là, je me suis dit, non, non, mais là, ça, ça fait trop de mal au corps. Euh, tu l'as fait une fois, tu le feras pas deux, et je l'ai parfait. J'ai jamais pris de. Voilà, jamais fumé de la marijuana. J'ai jamais été tenté par ces trucs-là. Je suis très peu. J'ai ah ouais. une mentalité très peu addictive. Direct le speed et c'est tout quoi. Non 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 vraiment. Bah Franchement. Si, T'as fait. Juste non, non non mais je veux dire non à part le speed, je, non j'ai pas souvenir. Ça me tente pas du tout. Ça me tente pas du tout. Euh, ah, par contre quand j'étais jeune, je buvais hein, dans la soirée et tout. Euh, je me suis pris des, des, des belles caisses. Hein. Et puis après à 25 ans, euh, je pense qu'on en est tous passés par là. Il arrive un moment, c'est en général c'est entre 25 on, ou 30 on ans. On dit c'était pas du speed alors c'était plutôt de la coke. Écoute, franchement, elle m'a dit que c'était du speed. Ça se trouve, elle, elle, elle s'est fait baiser par le dealer. Qu'est-ce hein, que j'en sais hein. Elle croyait que c'était du speed. Et en fait, il faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça parce qu'en parce qu en fait, en fait, tu ne sais pas ce que tu ce que Ouais, c'est clair. Donc, euh, des fois, tu meurs connement. Tu meurs comme ça, des fois. Et après, je m'en suis voulu. Je me suis Daniel, tu as tellement de choses à faire dans ta vie. Et puis, tu aurais mis tes parents dans une situation euh, cauchemardesque. Enfin, voilà, quoi, je m'en suis voulu. énormément, non, non, je n'en suis absolument pas fier. C'était bête, ça ne m'a servi à rien. Euh, Enfin bon, si, ça m'a servi à me dire que j'en prendrais plus. Euh, mais euh, mais j'ai détesté, ouais, j'ai détesté, euh, détesté euh, le faire, j'ai détesté, euh, voilà. Mais, euh, mais l'alcool aussi, hein, franchement, moi je comprends pas comment les gens peuvent être euh, addicts. Enfin, bien sûr je comprends le principe de l'addiction, je me reprends, mais je veux dire, je, je comprends pas comment on peut se laisser aller là-dedans, parce que vraiment, l'alcool détruit tout, ça détruit les liens sociaux, ça rend con, euh, ça fait dépenser un fric fou, en plus l'alcool est de plus en plus cher. Euh, quand tu dépasses un certain âge et que tu bois trop, tu rentres chez toi, tu t'es décalqué donc euh, là franchement la pomme tout ça on va boire parce que c'est le plaisir de partager ça avec vous mais euh, franchement si, si je bois allez si je bois dix fois par an c'est le, le bout du monde et je m'en porte très bien très très bien dix fois ah, moi et je bois cinq fois. Ouais, ouais, non, mais toi et moi, alors, pour le coup, on n'a pas ce vice, hein, du coup. Non, euh, non, euh, non, non moi, pour être tout à fait franc avec vous, je, je, je vous ferai jeu. Le, le seul vice que j'ai eu, euh, la seule addiction que je pense avoir eue, c'est à un moment donné une addiction à la, comme très commun, à la pornographie, à la branlette, quoi. Euh, je dirais je, entre 20 et 25 ans, je me branlais trop euh, mm. sur des pornos, voilà. Et là, là où il y a eu un phénomène addictif où euh, c'est vrai que quand. Euh, j'avais pas accès ou je m'interdisais l'accès. J'étais en souffrance. Euh, je trouvais le monde un peu plus laid. Là, là, là c'est vraiment le principe de l'addiction. Sinon, j'ai jamais été addict à quoi que ce soit. Je suis gourmand, mais enfin, je suis pas non plus obèse, donc euh, voilà, ça va. Et de Jonathan L. Bonjour Daniel et Robin. À propos de l'émission d'hier, je pense que prenez une décroissance et une réduction de la production qui, de toute façon, irait de pair, l'un étant la conséquence de l'autre est juste une ineptie pour Mec qui, sous prétexte d'avoir déjà joui de tout et s'estimant être accompli, voudrait à présent continuer de le faire sans être dérangé par l'agitation et le vacarme d'un monde qui croit. C'est du boboïsme de gauche, rien de plus. C'est ce que j'ai... C'est très juste, je te remercie d'ailleurs pour ton soutien. Euh, c'est ce que j'ai dit à, à Vertum, euh, dans son message où il disait, en, en fait c'est marrant parce qu'il nous accuse en plus de ne pas comprendre le monde actuel. Il dit, mais vous ne comprenez pas, les gens ont de plus en plus, de plus, en plus envie de d'espace de qu'est-ce qu'il a dit peu premier mot de sobriété alors s'il y a bien un truc dont les gens n'ont pas envie c'est de sobriété hein. enfin je dirais, il suffit de traîner sur Instagram euh, ou sur TikTok euh, cinq minutes pour comprendre que s'il y a bien une chose que le monde n'est pas aujourd'hui c'est sobre voilà alors, après on peut s'en plaindre mais euh, dire que les gens sont en recherche de ça c'est une folie euh, ça ne correspond pas du tout à la majorité à la recherche de marchés bio euh, d'attitudes éco-responsables mais en fait ils confondent ces potes bobos avec les gens voilà les bobos ont ces envies parce que euh, parce que c'est leur culture, euh, parce que. Euh, en fait, avant d'en arriver à se dire on va consommer moins, ils ont bien consommé. Euh, donc euh, donc tout, ça est, tout, tout ça est complètement faux. Il ne traduit pas du tout. En fait, il croit qu'il est dans l'air du temps, mais il n'est pas du tout dans l'air du temps. Je le répète, les, les, les jeunes sont. En fait, les jeunes sont écolos comme ils sont antiracistes. C'est-à-dire qu'ils sont éduqués à l'être. On leur bourre le crâne avec ça à l'école, à travers les films. Euh, on va dire, tous les gens qui ont un peu mon âge, on va dire entre 30 et 40 ans, sont un petit peu passés à côté de ça. Encore que nous, on avait nos rengaines, hein. on avait tu sais le trou de la couche de zone, etc. Mais euh, mais putain les, les jeunes de 20 ans aujourd'hui, enfin euh, quand ils t'en parlent de climat, c'est pas qu'ils sont concernés. Euh, bah, je dirais comme Roger va être concerné parce que je pense que Roger a un rapport esthétique à la nature. Je pense qu'il qu est sincère là-dedans. Il aime vraiment la nature. Je veux dire, il aime la voir, il aime que ça existe, il aime l'idée que ça existe. Je, je, Là-dessus, je pense qu'il ne qu joue pas un rôle. Mais mais les jeunes de gauche, il faut pas croire en fait, ils se lèvent le matin en pensant aux plantes vertes. C'est juste, c'est juste un réflexe pavlovien, gauchiste, idéologique. Ils sont écolos comme ils sont pro-palo, comme ils sont euh, antiracistes. C'est juste de la propagande en fait. Mais mais, mais, mais les gens au quotidien n'ont rien à foutre de l'écologie. C'est une réalité. Je dis pas que les gouvernants doivent s'en foutre complètement. Mais si quand même. Euh, pour, mais je veux dire pour les pour les gens, c'est n'est pas euh, euh, c'est pas à vous de vous en occuper au quotidien. Vous avez vous avez d'autres problèmes. Vous avez d'autres priorités. Sylvain Remise Yes. « He's back again and again. Bonsoir, est-il possible d'avoir des informations oui. sur la communauté des Braves dans le sud de la France Implantation, nombre, activité, etc. Il y a peu de renseignements sur le site internet, mais probablement c'est volontaire. Merci. » La réponse est dans, dans ta question. En fait, on, les, on, nos membres tiennent à leur intimité. Il n'y a pas du tout... Enfin, ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose d'extrêmement mystérieux. Mais à ce que tu peux faire... Je sais qu'une réponse de type, bah, t'as qu'à adhérer et tu verras ensuite, peut, peut paraître un peu cavalière, mais tu peux contacter. Il y, a, il, y a un, il y a une adresse de contact par mail où tu peux poser exactement la même question. Je, je ne gère pas cela, honnêtement. Je sais qu'il y a des communautés dans le sud il y en a à Marseille, il y en a à Montpellier, il y en a à Toulouse. Euh, je ne crois pas qu'il y en a à Bordeaux, d'ailleurs. J'ai toujours un peu le parent pauvre au Bordeaux de notre communauté. Euh, et puis il y en a aussi parfois entre ces villes-là. Donc tu, tu peux contacter dans un premier temps par mail si je, ce que je, je comprends parfaitement ça que tu as besoin de savoir s'il y aura moins 5-10 mecs avant d'adhérer pour ne pas être seul. Ça, je comprends parfaitement. Il euh, y a un, une adresse de contact mail, tu poses la question et, et tu auras ta réponse. Voilà, merci à, merci à toi. Baptou Ultra Solide Ouais. Euh, il me dit un don anonyme SVP, le pseudo se suffit à lui-même. Un don de plus de 1000 euros. Ah oui, bah, bah, voilà, c'est magnifique. Voilà, voilà. C'était pas ce truc que tu avait envoyé là. Faut pas dire le. Euh, non, non, c'est pas ça. Euh, mais c'est celui qu'il a dédié à Alban Gervaise, je crois. C'est bien lui. C'est ça, ouais. Alors, on peut dire, euh, on va en profiter quand même pour dire rapidement qui était à Alban Gervais. Alban, Alban Gervais. Euh, en mai, euh, donc là, c'est un, un article de 2022. Je te l'ai pas envoyé là parce que je viens de checker ça. Euh, en mai dernier à Marseille, un médecin militaire était attaqué au couteau devant l'école privée catholique de ses enfants par un homme pré euh, prétendant agir au nom de Dieu. C'est le, c'est le. Père qui avait été tué devant euh, ses enfants. Pourtant, l'enquête a rapidement écrasé, écarté la piste terroriste. Retour sur une affaire aux nombreuses zones d'ombre. Mardi 10 mai 2022, vers 18h, quartier nord de Marseille, devant le groupe scolaire Sévigné, établissement privé catholique, installé entre des rues ayant conservé l'apparence d'un village et les bars de la cité des tilleuls. Des parents attendent la sortie des classes. Parmi eux, Alban Gervaise, 41 ans, radiologue et médecin chef à l'hôpital militaire Laverange. Je ne sais pas si vous imaginez. Enfin, c'est. Là, vraiment, ces gens tuent notre, notre, notre élite, la vraie élite que, que tout le monde se doit de respecter. Radiologue et médecin-chef à l'hôpital militaire Laveran, venu raccompagner en civil deux de ses trois enfants. Âgés de 3 et 7 ans, ils viennent de le rejoindre. Soudain, un homme lui porte une dizaine de coups de canif à la gorge et au thorax en hurlant Je vais tuer. Malgré le danger, quatre passants et parents d'élèves parviennent à maîtriser l'assaillant pendant que d'autres alertent les secours à la police. On, on félicite ces gens qui, qui ont essayé d'intervenir. Ils n'ont pas pu empêcher l'irrémédiable, mais enfin ils n'ont pas pu empêcher cette mort, mais... mais ils ont essayé. Aux agents qui le menottent, il dit avoir agi au nom de Dieu, puis parlera du diable. En arrêt cardiaque, Allemand Gervaise est conduit à l'hôpital nord de Marseille. Il décédera 16 jours plus tard, victime d'un nouveau loup solitaire de l'islamisme, pour l'interrogation. Vous vous rendez compte? Ses enfants traumatisés pour toujours. C'est cette, cette tristesse, ce chagrin, cette haine qu'ils doivent re ressentir. Voilà c'est des choses qu'on... je me souviens parfaitement du visage très doux de cet homme qui avait l'air intelligent euh, absolument absolument horrible absolument horrible. On n'a vraiment que nos yeux pour pleurer quoi face à cette situation et euh, ce sentiment d'impuissance est, est insupportable: et je voulais donner un euro par émission mais j'ai eu la flemme Zouk, zouk zouk dit Gabriel C avec 50 euros Bah merci. Pourtant, on n'a pas fait 50 émissions, donc... Non, et euh, on n'en fera pas d'autres. Hein. <laughs> avant un moment. Euh, bah pourquoi pas, cela dit. Mathieu H. Yes. Merci pour tout ton travail, Daniel, ainsi que pour cette série de lives que vous avez réalisée avec Robin. Merci, merci de penser avec à Robin, effectivement. Ah, oh, c'est beau, c'est beau. Ouais, beau. On a des beaux dons hein, ce soir. Hein. Et merci encore une fois pour le don de 1000 euros, c'est fortement apprécié. Plus de 1000 euros, neuf et quelques. Ouais, Quelqu'un nous fait remarquer, loup solitaire, c'est une, une bien trop belle expression pour, euh, pour parler de ces connards de terroristes, hein, effectivement. Alors, Jérôme Lombard. Hey, mais avec un message. Ah, je le savais. Au dernier jour, il allait parler, j'en étais sûr. <laughs> bonsoir Daniel, bonsoir Robin. Je suis heureux d'avoir pu contribuer avec mes, avec mes moyens au projet Espoir. J'ai hâte d'en voir la concrétisation et de voir la ligne que tu portes, qui est la seule rationnelle à droite, montée en puissance. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Euh, je crois qu'au total, tu nous as envoyé 400 euros. C'est euh, fabuleux. Vraiment, merci pour ta régularité de, de métronome. On t'appellera Jérôme le métronome et on va essayer de rendre honneur à, tout, euh, à tous ses soutiens. Adrien Escheret yeah, nous dit renoncer à la croissance, c'est renoncer à notre talent et créativité, à, votre, à notre volonté de puissance, à nos ressources, à notre emprise sur la Terre et la matière. Bref, tout ce qui justement constitue notre image de marque en tant que blanc et qui inspire le respect, voire crainte des autres races, c'est renoncer à la puissance et en dernière instance, céder nos femmes à des extra-européens qui seront devenus plus riches et plus puissants que nous. Tout à fait, c'est tout à fait ça. En fait, je l'ai dit hier, mais c'était un des arguments les plus forts. Et que même si tu ne, comment dirais tu, tu n'arrêtes pas de produire, mais que volontairement tu produis moins, en fait tu décides d'évoluer moins vite. Je dirais c'est exactement comme un sportif qui déciderait de, de ne pas utiliser son plein potentiel afin de maintenir sa, sa place dans le top 10 ou le top 20, peu importe de, de quel sport on parle, et, euh, et qui dirait que ben, c'est un choix raisonnable, rationnel, parce que ceci, parce que cela. Et tu, bah, au coup de. Peu importe tes raisons. Alors, enfin, en fait, moi, ce que je dirais à un sportif comme ça, je dirais bah, pour toi, le, le sport n'est plus ta priorité. Donc, euh, tu, tu continues de faire du sport pour gagner un peu d'argent, mais en fait, c'est plus trop ta passion parce que sinon, tu ne penserais pas comme ça. Parce qu'évidemment, que si toi, tu ne travailles pas à fond, d'autres vont te dépasser. Bah, c'est exactement pareil pour la compétition économique. En fait, on, on se livre une, une guerre plus que jamais, je dirais, parce que maintenant, entre les grandes puissances depuis, je dirais, le, 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 le monde post-45, c'est-à-dire depuis l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima, euh, les nations fortes ne sont, ne, sont, ne sont font pas la guerre directement encore heureux. Et donc, elle, elle se livre une guerre économique. Donc, ne refuser de... C'est ça aussi c'est ne comprend pas, Julien, c'est que pourquoi c'est la guerre entre les pays, la guerre du PIB, la guerre de l'innovation, la guerre de la croissance C'est qu'en fait, la guerre est là, aujourd'hui. C'est-à-dire euh, le, 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 le pays qui sera le plus riche et qui innovera le plus en termes de nouvelles technologies et d'IA sera le pays qui dominera le monde pour des siècles et des siècles. Euh, pro Peut-être, euh, probablement. Donc, euh, donc c'est normal. En fait, c'est rationnel, ce que font les, les, en réalité les, 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 les nations. Euh, ce qui est moins, c'est la provenance des immigrés, c'est la masse, c'est euh, en fait euh, dès que de l'idéologie entre en jeu. Euh, mais ça, on peut en discuter, on va dire. Mais, euh, mais, mais voilà, effectivement, c'est un très bon argument, l'argument de la concurrence. Et ça, les, tu, les décroissants de gauche comme de droite n'ont jamais de réponse satisfaisante à cette question. C'est-à-dire, si nous on arrête de croître ou si on ralentit notre croissance, euh, est-ce que euh, c'est pas dangereux Voilà, que, que d'autres pays nous passent devant. Ah, ils sont là, bah... Euh, non, en fait, ils ont un argument un peu magique. Ils disent, euh, non, mais les autres vont nous imiter. Bah, pourquoi Pourquoi Je veux dire, euh, tout le monde n'est pas aussi concerné par la disparition des, euh, je sais pas, des, 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 de, tels, euh, de tels types d'arbres ou de tels types d'insectes que, que les Européens, en fait. Réveillez-vous, les mecs. Hein. Euh, tous, les, tous les peuples n'ont pas le même cerveau, n'ont pas les mêmes euh, désirs, n'ont pas les mêmes aspirations. Donc, euh, non, non, je, je suis pas d'accord avec ça. Euh, on est, on est, condam est condamné à la croissance. Voilà. Euh, maintenant, c'est comment faire en sorte que cette croissance ne rime pas avec, euh, euh, et bien, en fait, ne, ne rime pas avec euh, tout ce qu'on sait être désagréable et tout ce qui a rendu euh, une partie de notre vie euh, pénible, voire dangereuse dans les pays les plus remplacés euh, d'Occident. Voilà. Moustakish, Moustakish. Euh, un grand bravo et merci à tous les donateurs grâce à qui vous allez monter en gamme au bénéfice de l'avenir européen. Et bravo et merci à vous deux également pour l'effort, le travail et la constance. À zouzou, les amis. À zouzou, mon ami, à zouzou. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci à toi hein, pour Avec tes dons une réguliers. Petite hein. critique technique euh, précédemment ah. euh, pour ton site web que je te ferai parvenir. Ah, d'accord, ok. De Moustakish Ouais. ouais. Bah, si c'est <laughs> DanielCourson.fr, de toute façon, on ne l'utilisera pas après. Donc... On, alors, euh, on a Ewan, Ewan e C, qui ouais. nous donne 20 euros sans rien dire. Merci, c'est breton, je crois, Ewan, hein. c'est joli comme prénom, je trouve. Peut-être, ah, il, donne, il donne deux fois en fait, ah. d'affilée, merci à lui. Ouais, mais alors euh, faites gaffe à un truc, c'est que si vous ne voulez donner qu'une fois, euh, si vous cliquez, euh, peut-être il, il parlait de ça, Moustakish, euh, parfois quand non. vous cliquez sur, au moment où vous passez commande, quand vous mettez commander, il se passe rien pendant deux secondes et demie et vous avez l'impression que ça n'a pas marché. Et si vous cliquez deux fois, l'argent va partir deux fois. C'est un bug qui arrive chez certaines personnes. Donc, euh... bon, voilà. Si certains souhaitent être remboursés, vous nous It's contactez et on le fera. Ouais. <laughs> voilà. Yann reese qui donne 500 euros. Yeah. Salut Daniel, salut Robin. Sauf erreur, vous n'avez jamais évoqué Rainman de Barry Levinson. Mm -hmm. Dans ce Road Movie, Tom Cruise incarne un personnage détestable qui essaie de se rapprocher de son frère autiste pour capé, capter sa part d'héritage. Bon film, ouais. La prestation de Dustin Hoffman vaut le détour. On retiendra également la BO composée par... Je ne sais pas. Hans Zimmer. Ah ouais, bah il, est, il est de tous les, de tous les coups. Euh, donc euh, déjà, Yann, euh, je voulais te dire que j'ai réalisé quand j'ai vu ton nom apparaître dans les donateurs que j'avais pas fait euh, la description que je devais te faire. Mais tu m'as pas relancé. Alors dis-moi où tu en es par rapport à ça, tu vois de quoi je parle. Euh, pour le reste, euh, oui, bah, j'aime bien Rainman. Euh, c'est un film qui m'a pas non plus bouleversé. Euh, donc en, pour ceux qui n'ont jamais vu le film, c'est un film qui date de la fin des années 80 avec Dustin euh, Hoffman et Tom Cruise. D'ailleurs, on le voit plus du tout, Dustin euh, Hoffman, il commence à se faire vieux. Et c'est un des meilleurs rôles de Dustin Hoffman. Il est très bon, il joue un autiste euh, surintelligent, euh, notamment en mathématiques, qui compte très vite. Et c'est un film qui est très attachant. Oh, le le, le canvas est très simple, hein. c'est voilà le, le connard qui finalement euh, euh, au contact d'un frère qui est décalé mais qui en fait génial s'adoucit et se rend compte que, euh, voilà, que sa vie de golden, golden boy est vide euh, patati patata bon c'est pas c est, c est, c est, ça, ça réinvente pas l'histoire du cinéma mais c'est un film très agréable euh, qui, qui lui est agréable de revoir je suis d'accord euh, on a Zem. <laughs> Bonsoir les copains et merci pour votre super série de live. Une fois n'est pas coutume, ma question est pour Monsieur Robin. Ah Tu as connu une expérience pro dans le milieu audiovisuel français Comment tu le sais toi Pourrais-tu nous décrire ce que tu as vécu et si ce milieu est aussi gauchiste qu'on peut le penser vu de l'extérieur As-tu des anecdotes croustillantes à partager, notamment au sujet d'une personnalité du PAF Zouk mais je voudrais pas griller des gens quand même. Euh, ouais, ouais, ouais c'est vrai, j'ai travaillé dans le milieu audiovisuel français. Comme tout le monde ne le sait pas, <laughs> j'ai vu surtout euh, des, des, des acteurs qui faisaient du doublage. Donc euh, l'acteur très connu qui fait euh, la voix de Cartman, aussi, ah oui. euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bon enfin quand je dis que je les ai pas fréquenté, j'ai pas mangé avec, ouais. j'ai pas déjeuné avec, j'ai pas bu avec. Quand tu es un technicien en France, tu es une merde, tu n'es pas invité à la table. Ouais. Tu restes tu restes technicionné et tu es viré souvent. Mais enfin tu l'as vu, tu l'as vu dans le cadre de son travail. Ouais ouais ouais, il est sympa mais bon, quoi c'est Disons que c'est j'ai vu que c'était très pistonné comme milieu. <laughs> mmh. Si tu as euh, voilà un papa ou un oncle qui travaille à Canal+, euh, ça aide dans le CV quoi. Et sinon, euh, anecdote croustillante, euh, non, non, je préfère pas. Je préfère pas lâcher comme ça. Le clash d'hier a suffi, je crois. Non, mais euh, je réfléchis, ce qui est, si je me souviens, quand tu, voilà, quand, quand tu bossais euh, en région parisienne, ce qui était cool, c'est que parfois, euh, comme il sous-titrait et tout, euh, il était en charge de sous-titrer des films et des séries, et que parfois, euh, je les voyais un peu avant, avec, avec toi. Ça, c'était cool. <laughs> voilà, quoi. Donc, euh, avant les autres, euh, ça lui arrivait de voir des. Des fois, c'était deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois. Euh, des, 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 des trucs qui étaient très attendus par tout le monde donc il y a un côté un peu euh, privilégié voilà ah, j'ai vu aussi la <laughs> la voix de ah tu sais euh, celle qui fait la nonne euh, super connue là, dans ce film euh, la nonne qui chante là. ah euh... ah oui euh, Whippy Goldberg ouais <laughs> ah, c'est marrant ça <laughs> j'ai vu j'ai vu la voix et quand elle a parlé je fais oh mais Whippy Goldberg c'est une blague <laughs> c'est une blague ouais ah ouais euh, bah tu vois y a pas de mystère comme quoi très gentil d'ailleurs mais bon ouais. on la remigre Ouais, quelqu'un nous dit dans, dans le chat qu'il a préféré Tootsie avec Dustin Hoffman. Ouais, il est très bon dans Tootsie. Il a dit, mais c'est un très bon acteur, Dustin hein, Hoffman. Euh, du, bah, du coup, question suivante. Ouais, j'ai répondu un mais un à Mais posez lui des moitié, questions à lui, ça, je... me, ça me repose. Ah, J'apprends à le connaître Attends, aussi. J'ai déjà à la technique, je ne vais pas en plus faire le live. Que pensez-vous, de... que penses-tu vraiment d'Anguarsenau pour 2000 euros de, 2000 euros ah. Ah. <laughs> Alors... Euh... Pseudo Juju Pirate. Bonsoir R et D. Yeah. Merci pour le live sur la droite anti-moderne. Je ne supporte pas ce discours. Mes grands-parents agriculteurs sont nés dans les années 20-30. Ma grand-mère a accouché par terre à la maison. Ouais. Assistée par des nonnes qui lui disaient T'as crié quand tu l'as fait, maintenant tu vas crier pour le sortir. Wow. Il a fallu quelques heures au médecin pour arriver. Oh putain, c'est violent. Heureusement, elle s'en est sortie vivante et le bébé aussi. Histoire que je raconte à chaque fois que ces idées stupides sont remises sur la table. PS, si on veut un portrait très fin de ce type de bourgeoisie, je conseille la lecture du théâtre de Tchekov. Ouais. En particulier, la mouette et la cerisette. Bonne soirée. Ouais, ouais, ouais c'est intéressant comme anecdote. Euh, effectivement, le monde d'avant n'était pas, pas rigolo. Hein. Il y avait aussi des côtés euh, une côté assez, assez inélégants en famille, euh, c'était dur en fait, la vie d'avant était vraiment dure et on ne peut pas se projeter dans des vies qu'on n'a pas connues, mais on peut essayer à travers des récits qu'on en a eus, à travers des lectures. Et euh, oui, ce monde-là a vraiment existé. Gère, par exemple, le, les, les, les pères communiquaient peu avec leurs enfants en, en général, c'est-à-dire. Euh, euh, Jusqu'à ce que l'enfant est 14-15 ans, euh, pour, pour le père, un, un, un gosse c'était un tétard quoi. Donc euh, le père était absent, il allait au travail, quand il revenait, il fallait pas le faire chier. Euh, si vous parliez à table, il vous mettait une tarte. Enfin, il y avait un côté. Euh, Aujourd'hui, ça nous paraîtrait dément en fait de fonctionner comme ça. Mais la société entière était dure, donc les gens étaient durs. Euh, vous savez, quand on parle par exemple de l'antipathie des peuples de l'Est. Euh, au fond, est-ce génétique, est-ce culturel, je ne saurais pas dire. Plus on va s'éloigner du communisme, plus leur caractère va être un peu plus coulant, je pense. Euh, et, et à mon avis, un Français euh, du, du 19e siècle, euh, un, un daron qui revient du travail, euh, bah, il n'est pas aussi doux avec ses enfants que l'est un homme d'aujourd'hui, en réalité. Hein. Alors après, un homme d'aujourd'hui a d'autres défauts, justement, euh, mais, mais c'est à prendre en compte. Euh, Clément B. Yes. Salut Daniel et Robin, dernier jour de don. Je me lâche sur le pavé. OK, allez. Deux parties. <coughs> Quelle stratégie penses-tu sera la plus efficace pour détruire la ligne souverainiste populoconspi Je viens de regarder en partie le passage de Xavier Moreau chez TVL, juste Damien Rieu, d'ailleurs. Je suis étonné que Damien soit invité chez TVL et je suis plus que jamais convaincu que cette ligne de merde est l'ennemi principal. À droite, oui. et nous devons nous en débarrasser. Je ne, connais, je ne connaissais pas, je ne connaissais Xavier Moreau que de nom, pardon. Je savais vaguement qu'il était pro-russe et souverainiste, mais je ne m'attendais pas à un tel niveau de bêtise. Que ce soit sur la situation en Israël, en Ukraine ou autre, ses analyses sont catastrophiques. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y avait un type de LFI sur le plateau, et au final, lui et Moreau étaient d'accord sur pas mal de sujets. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les souverainistes ne sont en fait que des mélenchonistes avec une couche catho-réac. J'en profite pour lancer une crotte de nez à TVL oui. et leur ligne déplorable. Tu en parles depuis un moment qu'ils ont complètement basculé dans le complotisme, le tiers-mondisme et le pro-russisme, mais ne regarde pas cette chaîne. Mais ne regardons pas cette chaîne. Je ne pensais pas que c'était à ce point. À la fin de l'émission, Moreau a parlé de la situation en Ukraine. Il a pu recracher la propagande du Kremlin pendant quasiment 20 minutes sans la moindre contradiction. En affirmant des bêtises comme quoi la guerre était terminée et que la Russie était sur le point de gagner. De plus, je pense que les souverainistes sont des espèces de malades mentaux. Par exemple, sur Twitter, ils passent leur temps à spammer avec leur Frexit à la con. Exemple, déclaration quelconque d'un politique lambda, vite Frexit. Réponse, vite Frexit. Article random parlant d'un chien écrasé, vite Frexit. Mmh. Tweet parlant de tennis, etc., etc. Finalement, ce sont vraiment des abrutis qui passent leur temps à critiquer Zemmour parce qu'il fait 7% ce qui est, je le rappelle, 7,68 fois supérieur à leur ridicule Asselineau. Il méprise aussi Marine, qui bizarrement a bien amélioré son score depuis 2017 et son délire de sortir de l'euro sous l'influence du taré Philippot. Bref, si on devait retenir qu'un truc de mon message, les souverainistes sont des malades mentaux qui sont en réalité des mélanchonistes ré réactionnaires et leur ligne droite doit être ridiculisée. Bravo pour l'ensemble de la série, Espoir qui a été globalement excellente. J'ai hâte de découvrir tes nouveaux projets, Vive l'Europe, les Blanches et les Blancs. Oui, euh, je suis... bah, en fait, ce que, ce que tu dis, c'est ce que je dis, donc je ne peux pas être en, en désaccord, je ne dis pas que tu m'as copié, mais je suis ravi que tu aies pris conscience que quand je parle des souverainistes, c'est pas parce que j'ai une dent particulière contre, elle, contre eux, par jalousie ou je ne sais quoi, c'est que pour moi, leur ligne est vraiment médiocre, euh, elle tire les gens vers le bas, elle est populiste, alors le problème, c'est qu'elle fonctionne. Le problème, c'est qu'elle est basée sur pas mal de, de certitudes qu'ont les Français depuis longtemps. Et une certitude politique, parfois, c'est presque aussi euh, ancré qu'une certitude religieuse. Et donc, euh, euh, voilà, je vais te donner un truc qui est très ancré dans la tête des Français c'est l'anti-américanisme. Je ne dis même pas. La critique de l'américanisation de la société qui peut avoir un sens pour le culturel, on peut dire, on peut regretter qu'on consomme autant de problèmes, euh, autant de, pardon, de, produits culturels américains euh, au détriment des nôtres euh, et qu'on ne s'essaye pas, à, euh, voilà, en fait, on se ferme aux autres cultures parce qu'on est focalisé sur les cultures américaines. C'est un discours que maintenant je n'ai plus moi, mais que peut à la rigueur entendre. Mais en revanche, euh, ce ressentiment face aux États-Unis parce qu'ils dominent et que... Euh, et que voilà, euh, bah, tout simplement, on a perdu pour l'instant, en tout cas, la, la bataille des nations contre eux. Et ben, euh, il, est, il est très puissant dans la tête des Français. Euh, il est euh, voilà, Amérique, méchant, Amérique méchante, Amérique méchante, Amérique méchante. C'est vraiment un truc. Euh, c'est pas le bien en fait. Hein. Et, et les, les souverainistes se reposent là-dessus. Et tout simplement, mais ils accusent les Américains de telles choses, dont parfois ils sont coupables, mais parfois ils ne sont pas coupables. Et moi, je dirais que ce qui me déplaît le plus, c'est que euh, avec cette, leur, la ligne qu'ils ont. Et en utilisant ces biais dont, dont je viens de parler, euh, ces biais pro-palestiniens pro de, de la société française, par polydorisme, c'est-à-dire en gros toujours être de, du côté de la veuve et de l'opprimé, le palestinien est vu comme l'opprimé en chef, euh, anti-américain, anti-progrès, c'est toujours bien de critiquer. En fait, euh, là je ne parle pas de Roger en par, par exemple, euh, c'est toujours bien vu en France de, de tenir un discours euh, genre maintenant c'est nul, c'était mieux avant, euh, voilà quoi, il, il y a toujours ces. Ce truc, cette nostalgie, on va dire, ah, c'est pas comme autant Lino Ventura et, et, et Gabin, quoi, patati patata. Et, et voilà, quand, quand tu ressors un peu ces poncifs et que tu les manges, mélanges à, à un complotisme, de, on va dire, qui, qui, qui prend, bah, en fait, ça donne du succès. Et, et à ce titre, Télé-Liberté a vraiment vendu son âme au diable. D'une chaîne, je vous rappelle que Télé-Liberté est née de, après la mort de, de Dominique Vénère. En fait, ça devait être la continuation. Euh, Il faut vous rappeler ça pour montrer à quel point ils ont trahi l'esprit initial de TVL, c'est que ça devait être la chaîne euh, qui met en avant le nationalisme européen haut de gamme euh, pour faire survivre l'esprit de Dominique Wehner après son suicide. C'est devenu une chaîne réac de gauche pro-Poutine. Voilà, c est, c est, ça n'a plus aucun rapport avec le projet initial. Et quand de temps en temps, pour donner le change, ils invitent un identitaire comme Damérieux, ils font tout pour qu'ils soient en minorité face à, face à des mecs euh, qui, sont, qui ont un logiciel de gauche euh, euh, pur, voilà, comme, euh, comme Tabibian, comme, euh, comme tu l'as dit. Et tu as très bien dit. Euh, en fait, c'est moi, c'est ce, ce que j'ai appelé il y a quelques mois dans, dans un live, c'était peut-être même il y a un an en fait. Hein. Euh, c'est les boomers dissidents. C'est-à-dire ce sont des mecs qui. Euh, qui ont eu de l'argent dans la vie, qui sont soutenus parfois. Tu dis qu'en que, gros, Xavier Moreau a un biais pro-russe. Mais pas du tout. Xavier Moreau est payé par la Russie. Xavier Moreau est un professionnel. Euh, voilà, Xavier Moreau, c'est la, la voix du Kremlin. Donc, euh, donc déjà, il y a ça. Mais oui, il y a ce côté insupportable où, euh, depuis des pays, par exemple, où il y a moins d'insécurité, voire pas euh, par rapport à la France, par exemple, il va valoriser l'islam. Voilà, euh, sur le plateau, moi je l'ai trouvé détestable face à Rieux. Contrairement à ce que disent les gens dans le chat, moi j'ai trouvé que à a, a bien tenu le choc, surtout sur la question de l'islam. Euh, maintenant, voilà, euh, il lui a faire un pont d'or. Effectivement, je l'ai vu l'émission. Hein, je, je regarde. Euh, comme il y avait j'ai regardé en particulier et euh, je peux t'assurer que euh, ça m'a rendu fou. Quand il a pu. Dé Mais tu te rends compte, ça fait quand même. Ça fait un an qu'il dit que la Russie a gagné la guerre. Enfin, c est, c est, c est, ça devient une religion, quoi. Les, les, gens, les gens sont fous hein, en commentaire. Je, je veux dire, je n'arrive pas avec une solution à je comprends ta question, je cherche la solution, je cherche la solution. Euh, mais là, j'en ai pas tout de suite parce que, parce que le complotisme fonctionne vraiment, est très puissant et, et défie littéralement la raison. Euh, C'est comme les gens qui disent, en fait, euh, les États-Unis, ça marche que sur la planche à billets. Euh, sinon, ça s'effondrerait. Donc euh, voilà, donc après, c'est devenu, en fait, euh, Jovanovic a dit, euh, le dollar va s'effondrer. Et comme il s'est pas effondré, il a dit, mais en fait, ils ont fait fonctionner la planche à billets. Donc maintenant, c'est une monnaie fantôme qui fonctionne, mais qui ne devrait pas fonctionner. Et tu es là, ok, donc en fait, ce qu'on voit n'est pas ce qu'on voit, ce qu'on entend n'est pas ce qu'on entend, enfin, on devient fou. Et bah, ben, euh, Xavier Moreau, il n'en est mort pas. Genre, non, non, mais vous croyez qu'en fait, l'Ukraine se débat Mais pas du tout, la Russie a gagné la guerre. Mais d'accord, mais... C'est quand que le drapeau est planté dans Kiev hein, de russe, on ne sait pas. Donc euh, voilà. L'élément de réponse que j'aurais donné, c'est qu'en gros, il faut de l'argent, il faut de l'influence, voilà. Euh, pour euh, l'idéal, c'est voilà si si. Si je rencontrais un mec multimillionnaire, qu'est-ce que je ferais Je ferais une télé concurrente à Télé Liberté euh, et je paierais des gens qui font beaucoup de vues pour passer sur ma chaîne. Voilà ce que je ferais. Et crois-moi, tout le monde a un prix. Hein. Pas de problème. Donc, tu fais passer des figures même qui ne sont pas sur ta ligne, mais tu les fais, à travers tes questions, aller vaguement sur ta ligne. Et parce qu'ils sont passés chez toi, ils crédibilisent ton média. Tu fais passer et tu fais connaître des gens qui ont la ligne Identité Rationnelle. Euh, tu achètes des vues à GoGo pour euh, buzzer. Euh, voilà. Tu payes euh, des... Enfin, euh, des trucs qui ne se disent pas sur Internet, mais je ne parle pas de trucs violents, hein, mais je veux dire, tu, tu utilises des stratégies... Euh, pour emmerder le média voisin. Voilà. Et, euh, et voilà. Donc, euh, et, euh, franchement, c'est qu'une question de pognon. C'est qu'une question de pognon. Euh, TVL, c'est des millions d'euros par an de dons, euh, de, de mécénat, d'abonnements, etc. Donc, c'est très dur de rivaliser con contre ça. Et voilà. Donc, nouvel objectif euh... Euh, 10 millions, voilà. voilà, <rire> voilà. <rire> euh, on a Antoine, ouais. qui nous dit « Bonsoir Daniel et Robin ». Ah non, pardon, on a déjà aussi un, un don en euh, message de Guillaume C. Merci à lui. Ouais, et, et donc. Euh, non, je, non je, ça, ça rapporte, je te laisse. Euh, juste, je, je me suis rappelé qu'il y a aussi des questions auxquelles on doit répondre d'hier. Donc, je, je t'enverrai les, euh, okay. le, voilà, le, les numéros. Donc, quoi. Okay. Ah, okay. Euh, donc, Antoine nous dit bonsoir, Daniel et Robin. Ouais. Merci pour cette série de live qui restera dans les annales, c'est certain. Tout d'abord, je tiens à saluer le talent de Danny qui réussit l'exploit d'enchaîner 20 lives de plus de 3 heures en ch chacun en à peine un mois, et sans que cela ne devienne répétitif ni ennuyeux. Tout le plaisir est pour moi. Chapeau l'artiste. Aussi, une petite pensée pour Robin qui assure en régie et dont la présence permet d'agrémenter les lives de moments d'humour et d'échanges bien sympas, ça rend les lives encore plus chaleureux. D'ailleurs, Robin, es-tu allongé avec une PlayStation à disposition pendant que Daniel déroule Non, c'est avec une Switch. Une Switch. <laughs> Nous, on est Team Nintendo. Es-tu habillé euh, Oui, oui, ça va. Es-tu habillé je, je porte de la lingerie, en fait. Comment es-tu habillé <laughs> Qu'est-ce que tu portes Sinon, pour en venir à mon quotidien en France, je vis malheureusement dans une ville pas mal remplacée. Je suis assez inquiet pour ma famille et mes enfants, et d'autant plus ces Derniers jours avec le contexte que l'on connaît. Cela va peut-être vous faire rire, mais j'ai appris par cœur en arabe la profession de foi musulmane, la Shahada, hein, c'est pas bien ça. Qui est la phrase à prononcer pour devenir musulman. Et je ne la prononcerai pas parce que tu me la mets, et je ne veux pas la dire. Bah non, on veut pas. Et je compte avoir sur moi en permanence un petit courant de poche que je porterai dans la poche, poche intérieure de ma veste. Comme ça, je tenterai de me faire passer pour l'un des leurs si un jour j'avais la malchance. De tomber sur un djihadiste taré qui a décidé de me trucider. Ouais. Ok. On je peux comprendre l'idée. Également porter sur moi une arme d'autodéfense autorisée et je demanderai à ma femme d'en faire de même. Quand j'y pense, on a atteint un tel niveau de grotesque dans ce pays à force de ne pas vouloir euh, mmh. voir les choses telles qu'elles sont. Trois petits points. Je vous laisse. Je n'ai pas de questions à poser. Merci encore pour cette série mémorable et portez-vous bien. Sinon, il y a l'expatriation. <laughs> oui, oui, oui. Sinon, il y a se soustraire à ces équations, ne plus nourrir le, le système remplaciste français, et essayer de trouver sa place ailleurs, tant qu'on est jeune et qu'on peut le faire et qu'on peut se réinventer. Après, je ne te blâme pas de... Euh, si ça peut servir un jour, ah, c'est éviter de mourir. Que, ouais. mais, euh, mais malheureusement, enfin souvent, ça va tellement vite que tu n'as même pas le temps de, de signaler aux musulmans que tu l'es toi-même ou que ou lui faire croire. Euh, bon, mais, mais ça montre le niveau de désespoir et de crainte <laughs> qui règne en France et je te remercie de t'être livré là-dessus à ce titre. À la journée, quand j'ai dit des millions pour euh, TVL, ils ne croient pas, mais vous ne vous rendez pas compte en fait. Euh, euh, 15 à 20 employés, dans Paris, Intramuros, un, un studio, plusieurs caméras, renouvelées, sans salaires. arrêt le matériel, les salaires. défrayés les invités, les salaires, ouais. mais bien sûr, vous plaisantez ou quoi C'est 2 à 5 millions d'euros. C'est... Euh, c'est énorme. J'essaie une... de compter par mois combien ça fait... Non, mais, donc, mais, mais en électricité. Mais, je veux dire, bravo à eux. Du, ouais, du, ouais. du point de vue entrepreneurial, c'est remarquable. Ouais, bah, sûr, mais simplement, sûr, comme ils ne défendent ils... pas notre ligne, et bien sûr, ce que j'essaie de dire, c'est que j'assume aussi la responsabilité, euh, enfin on va dire, nous les identitaires, on doit assumer la responsabilité de notre échec momentané, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire en sorte que notre ligne soit numéro un déjà au sein de la droite. Euh, donc euh, voilà, je, je, je le dis, et, et, et pour y parvenir, je, je sais très bien ce qui nous sépare de ça, et je sais que c'est une grosse quantité d'argent parce que l'argent crée l'influence, l'argent crée les réseaux, l'argent crée les amitiés professionnelles, euh, et, euh, et voilà ce que, ce que je regrette, c'est que c'est TVL qui devait être ce média. Et, et simplement, je pense un peu par hasard, au moment du Covid, euh, ils se sont rendus compte, en ayant une ligne, on va dire anti-système, anti-Macron, bon, qui pour le coup était vraiment la leur, je pense, euh, qui était authentique, ils se sont rendus compte que. Bah, en fait, ça marchait deux fois plus de parler du Covid, de parler de Pfizer, de parler euh, en fait de, de l'épidémie que de parler d'immigration, d'identité. Ils se sont dit putain, on tient un filon. Et depuis, ils parlent que de trucs euh, complotistes. Voilà, donc, euh, voilà, ils ont fait leur truc, maintenant on doit y arriver aussi. Euh, voilà, après les gens, pour déconner, ils disent oh, Deux jolis de dons d'ailleurs sur YouTube. Euh, euh, ils disent il faudrait que tu rencontres Cassé, tu sais, celui le donateur. Euh, notre meilleur donateur de la série. Non, mais là, là, je parle vraiment de gens qui ont énormément d'argent. Et, et d'ailleurs, je parle d'un investissement. Si, si, euh, je trouvais un mécène comme ça, en fait, il ne s'agira pas d'un don en réalité. C'est que euh, le mec est un investisseur. C'est-à-dire, c'est lui en réalité qui achète les trucs. Euh, c'est lui qui, qui tient les comptes ou qui, qui délègue. Il délègue à quelqu'un pour tenir les comptes. Et le but du financeur c'est aussi revenir dans son argent à un moment donné euh, c'est pas euh, je dire, euh, sauf euh, coup de chance exceptionnel mais c'est comme, comme rêver gagner au loto, Quoi, personne te donne 10 millions comme ça contre rien euh, Mais euh, donc je parle d'un investissement évidemment si un jour ça tombait euh, dans le milieu identitaire que ce soit euh, autour de moi ou d'une personne que je connais, ce serait fabuleux ça changerait la donne bien sûr, évidemment euh, Roche Dizem euh, t'as envoyé ton don en double enfin c'est le okay. même, même commentaire ok d'accord merci si tu veux qu'on te rem rembourse ouais si ça eh suivait bah, et euh... eh bah tu fais un petit mail à ah. support ah. À... je t'ai vu venir avec ta blague on est juste joignable le lundi de midi voilà. à midi 10 ouais, exactement <laughs> non bien sûr en un clic on peut faire ça donc euh... Euh, ensuite on a un autre gros pavé de Patrick Zelisco. Bonsoir Daniel, bonsoir Robin. Yes. Dans tes lives, dont celui d'hier, tu parles régulièrement d'astronomie, ce qui est très agréable. Mm -hmm. J'ai un oncle, pilote de ligne, qui m'avait offert mon premier télescope pour mes 10 ans en mars 1996. Avec ce télescope amateur euh, mais de très bonne qualité, on pouvait déjà observer la Lune, Jupiter, Saturne, les Pléiades, oui. la Voie lactée et bien sûr l'éclipse totale de Soleil du 11 août 99. Beau souvenir en effet. À l'école, je faisais même des exposés avec des maquettes du genre si la Terre était ce noyau d'abricot, le Soleil serait ce fruit situé à l'autre bout de la classe, etc. Je voulais également revenir sur ton expérience vécue quand tu avais 13 ans, celle de ton grand-père qui était apparu dans ton rêve. Ouais. Je crois que tout le monde n'est pas au courant si, de ça. Si si si, j'en ai parlé en public. Tu as dit il y a quelques années dans un live que tu ne croyais pas en la vie après la mort mais que penses-tu mais que penses-tu de ces millions de témoignages à travers les âges et provenant de toutes les régions du monde qui relatent des expériences très similaires. De nombreux scientifiques et professionnels de santé se penchent sur ces cas de patients ayant vécu une expérience de mort imminente. Mmh. Sont revenus et ont, ont été capables de décrire avec précision la marque de la veste d'un infirmier, le contenu du repas de tel ou tel patient situé dans un autre bâtiment, etc. Des faits rapportés, il y en a des milliers et des milliers. Beaucoup de ces patients et docteurs à la base se définissent comme cartésiens. Mmh. Enfin, il existe de nombreux médiums avec de réelles capacités pour connaître et percevoir certains secrets familiaux passés, jamais racontés à l'extérieur. La majorité de ces ouais. personnes, la majorité des personnes qui revendiquent avoir ces dons sont des charlots, mais une minorité est bel et bien capable de certaines prouesses. Voilà encore, merci pour ces lives et à tous les camarades qui ont participé pour faire avancer la cause. Bonne soirée. Merci Patrick, merci pour tes, tes dons quotidiens en fait, hein, en réalité. Écoute, voici ma réponse. Ce... Ce que tu crois être des faits sont bien souvent des mots rapportés euh, qui ont réussi à convaincre des gens qui eux-mêmes ensuite en ont fait un papier et se sont dit ah c'est incroyable ce que m'a dit telle personne correspond à quelque chose que j'ai vécu ou ressemble de près ou de loin à un élément factuel donc c'est de la magie en quelque sorte mais je vais dire je vais parler de cette chose là vous trouvez pas bizarre que les apparitions de Jésus ou de la Vierge publiques dates de périodes euh, qui sont antérieures euh, à la période euh, ou enfin, au moment historique où les hommes, en fait, ont tous eu des caméras dans leur téléphone. C'est-à-dire, euh, c'est marrant, hein, depuis que, en gros, dans pas mal de familles, il y a des caméscopes, ensuite, ça a été des caméras h Super 8, après, h 8 après, ça a été des caméras dites DV, après, euh, les caméras, ça a été tout simplement nos smartphones. En fait, en gros, depuis 30 ou 40 ans, que je dirais dans, dans un. Dans dans, dans, dans 50 mètres carrés, voilà, ou 100 mètres carrés de, non, 1 kilomètre carré plutôt, 1 kilomètre carré de surface, il y a toujours une, deux, trois, quatre personnes qui peuvent filmer à l'instant même quelque chose qu'ils voient et qui sort de l'ordinaire. Ça n'arrive jamais. On n'a jamais vu d'apparition de la Vierge depuis qu'on a euh, des téléphones portables qui peuvent tout filmer. C'est quand même bizarre, non Il y a eu une histoire de statue au Japon de la Vierge qui pleurait du sang, qui a été filmée non-stop, mais je connais plus trop ouais. les détails. Est-ce que ça a été authentifié et... Je ne sais pas. Je ne je... sais pas trop quoi dire d'autre que je n'y crois pas, tout simplement. Euh... Après, je... les... les expériences, il y a un mot comme ça, c'est EMJ ou quelque chose comme ça. C'est en fait quand tu as quelqu'un qui est mort. Euh... Non, EMI. EMI. Expérience de mort imminente. Non, pardon, mais ça, c'est pour ceux qui ont failli mourir et qui voient la lumière au bout du tunnel. Là, je parlais quand tu as, par as un proche qui est mort. Il euh, y, a... y a un mot qui, qui dit ça c'est qu'en fait, un peu après sa mort, tu as l'impression que tu l'as vu quelque part. Par exemple, tu sens sa présence. Mais c'est une impression, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu, tu penses à elle ou tu penses à lui, et, et au moment où tu y penses, tu entends une chanson euh, qui était sa chanson préférée, ce genre mmh. de truc. C'est un mot. Euh, et, et en fait, en réalité, c'est une, une, une coïncidence. Moi, enfin, bon, C'est mon avis. Hein. C'est une coïncidence, et ton cerveau l'interprète comme un signe mmh. euh, mystique. Mais euh, pourquoi ça te paraît très vrai C'est parce qu'en fait, en fait, il est bon. En fait, c'est une question de survie psychique. C'est En fait, c'est ton cerveau qui crée cette sensation de bien-être. Qui te, qui te rend euh, la, la présence de l'autre comme tangible euh, pour que au fond de toi, tu dises, bon, OK, la personne est morte, je la reverrai plus en chair et en os, mais, mais elle est toujours au fond de moi. En fait, tu as intériorisé ta relation avec elle et à, en quatre guillemets, elle, ça paraît con de dire ça, mais elle est en toi. Euh, et, et ça, euh, bah, par exemple, moi, je l'ai vécu quelques... C'était quoi C'était euh, deux ou trois semaines après la mort de mon père. En fait, j'ai fait un rêve où j'avais l'impression que j'étais allongé à côté de lui dans l'hôpital et que euh, je m'assoupissais en même temps que lui. Et en fait, euh, j'ai eu, euh, dans mon rêve, hein, j'ai eu l'impression qu'il me, qu me serrait la main très fort, et si fort que ça m'a réveillé. Et en fait, ap après, j'ai eu une sensation de bien-être jusqu'au lendemain matin, parce que j'avais l'impression que mon père m'avait envoyé un message de l'au-delà, quoi. Et, euh, mais en fait, au fond de moi, je sais bien que c'est faux. Euh, mais mais, euh, mais c'était pas désagréable sur le moment. Et euh, je pense que si j'avais d'autres croyances, je l'aurais interprété comme quelque chose de mystique. Alors que je, je, je suis persuadé que c'est mon cerveau qui a. En fait, c'est pas c'est pas dur à comprendre. C'est que euh, en fait, mon cerveau pense à, aux défunt et, et en fait crée des des, des images mentales. Euh, voilà, et c'est tout. C'est ça les rêves. Hein. C'est comme les rêves érotiques. On est bien d'accord que quand vous faites un rêve érotique, vous baisez pas vraiment être la meuf. Mais ah bon ça vous paraît extrêmement ouais, ça vous paraît extrêmement réel. Euh, ah oh, je dis donc, tiens. Ah ouais, euh, 200 ouais euros. en effet, en effet. Ouais, ouais, non, c'est décevant. C'est décevant, euh, la pour je, ces je pense. Que, je pense que l'exemple la, 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 le, est bon, quoi. Est des, des... Ah, mais non, je sais pas toi, moi, j'en fais presque plus des rêves érotiques, mais quand j'étais ado, je pense qu'on a énormément de, de testos, on a du, du sperme qui ressort par les oreilles, puis en plus, on... <laughs> On est tellement neux qu'on ne sait pas euh, comment euh, obtenir la femme et donc en fait cette frustration fait qu'on fait des rêves reste érotiques et Il y a des rêves érotiques qui sont ah oui. tellement qui paraissent tellement crédibles euh, que tu en viens même à te jouir dessus. Hein. Ça arrive, enfin euh, moi ça m'est arrivé quelques fois, c'est rare mais je euh, crois que ça m'est pas arrivé souvent. Mais, mais t'es pas loin quoi. Enfin au moment as l'impression que tu vis un orgasme dans ton rêve, c'est super agréable d'ailleurs. Mais sauf que voilà. Et donc je pense que pour la lumière au bout du tunnel, c'est ça. C'est en fait le cerveau est sur le point de déconnecter. Et il y a un, un processus, euh, je pense que ça sera expliqué un jour par la science, tout simplement. Voilà. Après, c'est un... très fabuleux hein, qu'il y ait un monde d'après, mais je, malheureusement, j'ai du mal à y croire. Florent, donc, euh, merci pour les 200 euros. Merci sur beaucoup. le chat YouTube. Merci. Chrono, euh, anti kikujap l'homme du manifeste, <laughs> qui donne 100 euros aussi. Je vais lire tes. Je vais lire. Des commentaires. Alors, le premier, je ne sais pas lequel c'est. On va faire dans le désordre. L'anti-américanisme est arrivé au milieu des, des 90s. Euh, est le pire des poisons des Français blancs médiocrité, inadaptabilité, incapable de parler anglais, etc. La nouvelle génération sera aussi anti-US car en grande partie maghré maghrébine ou africaine. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, je, je, il, il écrit de très bons commentaires, euh, Chrono. On te remercie déjà pour tes dons euh, importants mm. et euh, pour la qualité de, de tes réflexions que je partage souvent. Euh, oui, je, maintenant, ça surprend un peu les gens, mais depuis quelques temps, je, je, je suis assez pro-américain dans, dans mes discussions, parce que je pense que maintenant, c'est un marqueur identitaire blanc, en fait, de se dire pro-américain. En fait, se dire pro-américain, c'est pro... -américain, pro en fait, pourquoi, pourquoi je suis pro-américain déjà Parce que les, les Américains dominent et j'aime la domination. C'est-à-dire, je m'identifie en tant que blanc au succès. Américains en tant qu'occidental. Et euh, en fait, c'est pour moi, c'est une fierté civilisationnelle. Euh, les Blancs, en fait, d'ailleurs, c'est quoi les Américains C'est des Français, c'est des Allemands, c'est des Anglais ethniques. Voilà. Et ces gens euh, ont réussi, euh, les, les Wasps ont réussi à dominer le, le monde. Des Irlandais Donc, et des Rital Ouais, des Rital. Ouais, non, mais Rital sont arrivés après. Et, euh, non, mais, mais c'est génial. En fait, les États-Unis, ce, ce qui est génial, c'est Il y a des choses que j'aime pas hein, chez les États-Unis. Euh, D'accord, mais. Mais ce que j'aime bien, c'est que jusqu'à ce que eux aussi euh, ils, ils soient submergés par le nombre d'immigrés et les naissances latinos, en fait ils, ils ont réussi à construire ce qui était le rêve voltairien, en fait le Voltaire rêvait d'une Europe cosmopolite européenne où en fait il n'y aurait plus de euh, pas qu'il ait plus d'affrontements mais on va dire qu'il y aurait une espèce de, de diplomatie sur qui unirait, euh, qui permettrait en fait euh, quelque part il a rêvé Schengen hein, Voltaire, le, le, le vrai Schengen dont on rêve nous aussi euh, l'Europe des Européens. Euh, et, et, les, et Les Européens, les Euro-américains l'ont réalisé là-bas, et il y a eu un, un, un moment de, 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 de majesté, voilà, qui a duré jusque dans les années 80-90, jusqu'à ce que le nombre d'immigrés, en fait, non blancs, bah, commence à avoisiner, voire bientôt dépasser celui des, du nombre de blancs en Amérique. Il y a eu un, des moments géniaux où, en fait, chaque, je dirais, chaque ethnie blanche aux États-Unis était à sa place. Euh, les, les, alors les, les, par exemple, les on t'a parlé des Italiens un peu pour rigoler, mais ils sont arrivés. Alors évidemment, il y a une partie de ces gens qui, qui venaient du crime organisé, qui l'ont perpétré là-bas, perpétré là-bas, ça donnait la mafia. Mais après, qu'est-ce qu'on a vu Enfin, moi je trouve ça génial, même ça m'émeut. C'est en fait, c'est les artistes italiens ont eu besoin de la puissance économique des Américains pour réaliser des films exceptionnels. Combien il y a de réalisateurs américains qui sont d'origine italienne C'est fabuleux. En fait, euh, Tarantino, Scorsese. Euh, Francis Ford Coppola, il euh, y, 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 y en a une chier, quoi. Je veux dire, On pourrait faire une émission entière sur les réalisateurs italo-américains euh, qui, qui ont marqué l'histoire du cinéma et les acteurs aussi, euh, Al Pacino, Robert De Niro. Euh, donc c'est ça la, la, la réussite des États-Unis, je suis d'accord avec toi. Euh, de plus en plus, se dire anti-américain deviendra un élément subversif, à dire euh, pro-américain, pardon. Ça, ça deviendra subversif. C'est-à-dire euh, au collège ou, euh, ou même euh, sur les plateaux télé, hein. dire moi je suis pro-américain, je pense qu'on devrait s'inspirer de, 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 de la réussite des américains, etc. C'est très mal vu dans le milieu culturel, hein, dans, dans le milieu, moi j'ai fréquenté, ces milieux un peu gauchistes, du cinéma, du théâtre. Euh, tu te disais pro-américain. Alors ces gens, ces gens vont voir, la, les trois quarts des films qu'ils vont voir sont américains, mais à part ça, les films américains sont nuls, quoi. Donc il y a une hypocrisie qui est, qui est lamentable euh, là-dessus, euh, voilà quoi. Tiens, regarde le 1170. Ok, je regarde. Moi, je, je vais lire celui de Emmanuel Dion. Et ou là Qu'est-ce qui va dit... se passer là Attends, ouais. Oh là, là 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 Oh putain Merde Je voulais faire style dans. Je rien crois que c'est le moment <laughs> de sortir le whisky. Hein. Je vais répondre ouais. un petit peu. Je vais mettre du temps à répondre à la prochaine et voilà quoi. Oh putain Oh putain Oh putain Il oh, y en a qui va pas être content, c'est cassé. Hein. Ouais. Cassé! Voilà, cassé là, ça va être compliqué. Oh, hein. cassé! Comment te dire? Tu, tu étais le préféré de mon âme, mais un bel est arrivé et a mis sur, sur la table une somme que je ne pouvais pas refuser. N'y voir rien de personnel, c'est une question de, celle du business. Voilà, euh, t'étais mon préféré jusqu'à ce que tu sois pas mon préféré. Voilà, c'est tout ce que. Voilà, du fait mais c'est tout ce que je peux dire, du fait <laughs> mais voilà. <rire> Ils étaient <laughs> gourmets. Ils étaient dégoumés, <laughs> Il gourmets. Dégoumé. Euh, N'oublie pas, Chronos a posé une autre question qui est très intéressante également, mais qui a disparu. Ah oui, oui, oui. Excuse-moi. Détronaide, ouais. Cassette et détronaide. Cassette euh, Merde, elle, est, elle a disparu. Ouais, Attends, elle a disparu, je en je effet. Pas, je la retrouve ai avant récupéré... toi, si je la retrouve avant moi. Alors, ne penses-tu pas que la ligne raciale blanche, oui. entre parenthèses, conservatisme racial, est dépassée, telle la ligne catholique, conservateur. Hop, il y a un don qui arrive en même temps qui m'a trollé ouais. la page. Conservateur juste de la nostalgie des années 80-90, de la pub Gilette, des films d'enfance, etc. Excellente question. Euh, C'est un sujet douloureux que je vais traiter après cette série de live, après m'être pris quelques vacances quand même, grâce au dons qu'on vient de recevoir. <laughs> Ça ah, fait pas partie de la cagnotte, ça c'est juste pour les vacances avec les copains. Non, non, mais fabuleux. Euh, deux choses. La première, c'est que tu as raison, enfin, tu... Pour certains pays, tu as raison. C'est-à-dire les pays qui ont au moins 10 à 20% de non-blancs installés chez eux durablement et qui ont la nationalité du pays en question. Je citerai notamment, j'en oublie probablement, mais je citerai à, à la louche la France, la Belgique, l'Allemagne... L'Angleterre, probablement l'Irlande, euh, probablement l'Italie, malheureusement, et euh, les États-Unis et le Canada, donc ça fait quand même beaucoup de pays. Dans ces pays-là, tu ne peux pas politiquement tenir une ligne raciale intransigeante, c'est-à-dire. Alors déjà, déjà, tenir une ligne raciale, c'est-à-dire dire. dire ouais, déjà, ça, ce serait magnifique. C'est-à-dire dire nous sommes un parti euh, qui voulons euh, garantir que l'avenir du pays sera un avenir européen, et que nous maintiendrons, voilà, notre engagement, c'est maintenir la population de souche ou autochtones européenne en majorité sur notre sol, ou la faire redevenir majoritaire sur notre sol, parce que nous sommes les bâtisseurs de cette nation. Déjà ça, déjà serait fabuleux. Voilà, c'est pas on vire tous les noms blancs. Voilà. Euh, donc, déjà, on est quand même assez loin de, de, de l'affirmation... De, de l'identité de sang d'une nation, donc de l'ethno-nationalisme pratique, on en est loin. Donc, à plus forte raison, on est encore plus loin d'un moment où on va dire alors, non seulement on arrive au pouvoir, euh, salut, les races, ça existe, euh, en fait, on veut que des blancs, et peut-être, petit à petit, on va faire dégager tous les non-blancs, y compris ceux qui sont sympas. On en est à des années-lumière, donc je suis parfaitement d'accord avec toi que c'est imprenable et, et c'est stupide euh, de prétendre qu'une ligne comme ça peut avoir une chance. De l'emporter politiquement dans un système démocratique. En revanche, euh, voilà, ce que je crois, c'est qu'il faut une ligne de bon sens. En fait, sur la question identitaire, sur les autres points, je pense que Zemmour a fait des conneries, mais sur la question du programme identitaire et sur l'immigration, je pense que Zemmour a fait du bon travail. Il faut aller vers ça, euh, corriger quand même le discours assimilationniste en expliquant que l'assimilation n'est possible. Euh, en fait, l'assimilation est invisible pour moi elle est, elle est jamais possible d'arrêter l'assimilation mais, mais quand elle ne fonctionne pas elle n'est pas très grave euh, cette assimilation, enfin, ce cette volonté d'assimilation, même si elle est dans l'échec même si elle, elle échoue c'est pas grave parce qu'il y a peu euh, d'éléments étrangers mais quand il y en a beaucoup l'assimilation devient impossible et donc on a une société communautarisée euh, où, et pour se sortir de ça il faut arrêter l'immigration pour éviter que les communautés étrangères grossissent en nombre sur le territoire et euh, il faut un état fort, un pouvoir fort une police forte voilà, donc en gros réduire voire arrêter l'immigration en provenance on le sait hein, du Maghreb de l'Afrique subsaharienne euh, et, euh, et du Moyen-Orient et euh, combler avec une police en fait une ligne libérale sécuritaire voilà. mais ce qui n'empêche pas après qu'il y ait euh, des mouvements idéologiques ou communautaires comme les braves qui euh, représentent des safe space blancs au sein d'un pays qui ne l'est plus tout à fait voilà ça c'est le premier élément de réponse à ma question L'autre élément, c'est, je suppose que toi tu habites en France, bon là, donc tu as, as une vision, euh, en fait ce que tu dis est vrai pour la France, mais c'est pas vrai de la moitié des pays d'Europe. Voilà, la moitié des pays d'Europe pourrait tout à fait, euh, la moitié des peuples européens pourrait encore aujourd'hui faire venir au pouvoir quelqu'un qui tiendrait une ligne. Je ne sais pas, un, un, un président croate pourrait dire, voilà, je, je un président d'extrême droite croate pourrait dire, mon objectif est de, est de faire en sorte que la Croatie reste un pays à forte majorité ethnique croate et européenne. C'est-à-dire que je privilégierais en, privilégierais en tant que président, j'ai pris la Croatie, j'aurais pu parler de la Roumanie, j'aurais pu parler de la Bulgarie, euh, mais bon, la Croatie, c'est un pays qui, qui en, économiquement, se, se porte bien, et donc, euh, qui en plus, c'est un beau pays, etc. Donc, euh, potentiellement, il y a pas mal de gens qui pourraient essayer vouloir de, de vouloir s'installer maintenant en Croatie. Ben, un président croate pourrait tout à fait arriver avec une ligne, non pas raciste, il ne faut pas exagérer, mais identitaire croate identitaire blanche, en disant, la Croatie est un pays de population blanche euh, balkanique et doit le rester en majorité, euh, si ce n'est pas constitutionnalisé, le constitutionnaliser, euh, et ce sera l'objectif de ma politique. Ça, c'est tout à fait envisageable. Mais dans les pays qui n'ont pas, je me répète, encore qui n'ont pas encore fait ce choix terrible de la naturalisation de non-blancs. Euh, duquel il est, il est très difficile de revenir en arrière après ça. Il faut vraiment un pouvoir très très fort. Il faut vraiment un mec euh, bon euh, qui... Faut, en fait, un, là, il faut un sauveur. Quoi. Euh, et on en est loin. Boum. Euh, merci, j'ai oublié Arnaud. Une question pour pimenter un peu la soirée. Tu réponds quoi à tes détracteurs qui disent que tu tapines pour Israël désormais Oh je m'en fous complètement, je m'en fous, alors à un niveau, euh, Déjà, je, en fait je comprends pas, je suis tellement plus dans le logiciel sioniste anti-sioniste que je comprends même pas la critique, c'est-à-dire c'est comme si quand je soutiens Israël contre la Palestine, c'est comme si je croyais que qu'Israël allait m'apporter quelque chose en échange, euh, je sais pas, de l'argent ou de, ou de la renommée ou qu'il y aurait une association, je sais pas quoi... Euh, identitaire entre nationalistes blancs et nationalistes juifs, c'est même pas ça. C'est juste, en fait, il y a deux camps et il y en a un à choisir. Si on pose la question que je préfère, euh, je, trouve, je trouve les Israéliens et les Juifs plus civilisés. Euh, je, je, voilà. Si, si, si de toute façon, si, si j'étais un, un, un dieu et que j'avais le choix entre deux peuples, je maintiendrais le, le peuple juif sur terre au détriment du peuple palestinien. C'est tout. Donc mon choix, c'est un choix de raison. Et je tiens à dire qu'ailleurs qu'avant. Euh, en fait, euh, je reviens de loin parce que euh, j'étais en fait moi dans les années, euh, je sais pas en 2008, 2010, 2012, j'avais un dis discours même 2014, même quand je suis passé chez Topa j'avais un discours anti-israélien qui était non réfléchi et pavlovien. Je, euh, en fait, ça s'arrêter vraiment le, en 2015. En fait, en 2015 quand il y a eu le Bataclan, je me suis dit mais putain Daniel, c'est les mêmes gens en fait, c'est les mêmes gens. En fait, je me suis dit ce que les gens, ce que les Israéliens subissent depuis des décennies. Ben, maintenant, ça arrive en France et ça arrive de plus en plus souvent. C'est les mêmes musulmans dans l'esprit. Et, et en fait, j'ai eu une, une crise de conscience et même une crise de sens. Je me suis dit, mais, mais pourquoi tu soutiens les Palestiniens en fait quoi Enfin, ça n'a aucun sens. C'est un pays qui était étranger, une religion qui était étrangère. Euh, en plus, des crimes au nom de la Palestine sont commis en Europe. Et les, et les Israéliens ne m'ont rien fait de mal, bon sang de bonsoir, quoi. Donc, ça n'a aucun sens qu'en tant que nationaliste blanc, je sois contre Israël. Et quand on voit, quand on voit la cruauté avec laquelle euh, ils ont massacré euh, des, des, des vieillards, des, des femmes, des enfants, on ne peut que être du côté israélien. Euh, c est, c est, ça me paraît évident, bien sûr. Non, puis, j'irai même plus loin que ça. Euh, au, au fond de mon cœur, j'ai un rejet du monde arabo-musulman qui est absolu. Absolu. Moi, j'ai atteint un niveau. C'est le, le 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 mot haine est insuffisant. <laughs> il ne recouvre pas l'étendue de ce que je ressens. Euh, c'est euh, en fait c'est une désinvolture qui est qui est euh, qui pourrait effrayer. C'est-à-dire euh, quand on me dit il euh, y a des Palestiniens qui sont morts, c je suis c'est c'est par delà la 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 tristesse ou, ou la joie. Enfin, je suis dans un cosmos qui est euh, c'est comme si tu me disais ce matin j'ai écrasé une mouche, tu vois, c'est... Pourquoi tu m'en parles? Euh, vraiment, j'ai atteint ce niveau-là. Donc euh, si tu veux, les mecs et les Pro-Juifs, oh là rien à foutre. Fin. fin. Ouais. Euh, Adrien Esqueré. <laughs> Hello. Nous dit l'hyper croissantiste JM Corda. Ouais. Après avoir sacrifié son beau projet DBL sur l'hôtel de la crypto-monnaie ultra rapace. Et passé maintenant dans la war room Qu'est-ce que c'est du musulman Andrew Tate ah, accord. Ouais. Qui, est, qui avec l'argent de ses adhérents est en train de distribuer massivement la soupe aux palestiniens ouais. et Tate lui-même qui depuis sa cellule de prison se retrouve dans le même camp pro-palestinien que la Greta Thunberg qui lui avait jadis Pas faux. traité de petites bites, c'est pas cocasse tout ça. Très intéressant comme commentaire. Tous les voix du, du, du tiers-mondisme mènent euh, au soutien en fait. Au, euh, que ce soit par la gauche ou par la droite, euh, j'irais anti-moderne. Euh, donc en gros, qui dit l'Occident, ça pue, c'est moche. Mais ben, en fait, euh, tu commences par aller à l'est, et puis après, tu vas trop à l'est. Même l'est ne te suffit pas, puis tu finis en Orient en fait. Euh, mais, mais dans le cas de Tate, c'est pas, je veux dire, c est, c est, tout ça n'est pas théorisé, n'est pas idéologisé. Hein, c'est juste que, en fait, c'est un marketeur. Il y a de plus en plus de musulmans dans le monde. Les musulmans sont des consommateurs de contenu comme les autres. Et donc, en leur faire des clins d'œil, c'est vendre leur vendre des produits. Ça s'arrête là. C'est détestable, mais ça s'arrête tout simplement là. Euh, voilà quoi. Enfin, je veux dire, juste imaginez, imaginez que j'ai une ligne de droite anti Macron, anti gauche, anti LGBT, tout en valorisant le côté euh, viril, euh, même si nous on sait que c'est pas de la vérité, mais viril de l'islam. Mais j'aurais pas, bien évidemment, j'aurais pas 27 ou 30 000 abonnés, j'en aurais, aurais 200 000, c'est une évidence. C'est évident. Si je passais mes vidéos à dire, euh, euh, voilà, euh, le problème c'est pas l'islam c'est la gestion de l'islam, euh, je sais pas quelle connerie, euh, et de toute façon nos vrais ennemis sont ailleurs, mais laisse tomber avec le même talent dans, dans le mot avec la même façon de clasher et tout mais j'aurais dix fois plus de, 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 de followers et ben voilà, il ben y a des gens qui se posent pas la question et, euh, et qui sont là juste pour la gamelle et, et les gens que tu as cités en font partie, notamment Andrew Tate euh, Gaza Gazé, <laughs> <Il> nous dit <laughs> Dany, triste d'avoir appris la fin de tes entretiens VE Yes, yes, ouais. À chaque fois que je pense à toi, j'ai la musique originelle du programme qui me vient en tête. Ah ouais. Souvenir d'arriver en gare de Elviv et de l'avoir diffusé à fond devant la gare avec Steph de Kiev pour te rendre hommage. Ah, c'est Anecdote sur Vive il y avait un restaurant tradit bien noté en mode ambiance de guerre où le serveur passait avec un flingue et tirait à blanc sans prévenir en hurlant sur certains clients pour créer de l'ambiance. Eh ben. En bon français, nous avions peu goûté à cette atmosphère. Ma question. L'interview vive l'Europe dont tu es le plus fier, celle que tu regrettes, celle où tu as le plus ri, celle passée le plus inaperçue que tu souhaiterais nous recommander Perso, j'ai souvenir de celle sur le rap pour laquelle tu t'étais rendu à Berlin. Je me rappelle. Et ouais. l'émission fleuve sur la Bible avec euh, Geoffrey Marot <laughs> et Assane Occident. Non, il y avait pas Geoffrey, c'était juste <laughs> c'était d'une longueur infinie, quoi. Et il avait parlé de la, de la Genèse. Euh, il, il voulait, voilà, faire un, une sorte de en fait un résumé du livre de la Genèse de la Bible qu'il avait lu et ça avait duré 4 heures effectivement c'était un espèce de bloc monstrueux mais, euh, mais qui avait bien plu euh, l'émission dont je suis le plus fier n'est plus en ligne c'est une des rares qui a été supprimée par Youtube c'est une émission avec Pierre Vial euh, je crois... Que la mission était franchement, il n'a pas été radical, mais il a employé le n-word à un moment donné et on a dû être signalé par quelqu'un. Alors qu'il n'a pas employé en plus de manière euh, avec une insulte raciale, on n'a pas eu de problème judiciaire par exemple. Mais euh, YouTube a considéré que c'était euh, pas dans ses euh, voilà conditions d'utilisation. Euh, et pourquoi je suis fier de cette interview de Pierre Vial, c'est parce que euh, je, je pense que j'ai posé de bonnes questions et qu'on n'avait jamais fait vraiment un entretien un peu personnel à Pierre Vial. Et donc, j'ai mêlé un peu questions politiques et questions personnelles, et il y a pas mal de fois où il a été ému. Et, et ce qui m'a plu, c'est qu'à la fin de l'entretien, bon, c'est du hors-champ, hein, mais il, il m'a vraiment remercié chaleureusement. Il m'a dit euh, Je ne vous connaissais pas, enfin, pas vraiment, j'ai accepté comme ça euh, par caramaradie nationaliste, mais, euh, mais c'était vraiment un bon moment, euh, j'ai aimé me livrer là-dessus. Euh, voilà, il m'a dit quelque chose comme c'était un des meilleurs d'entretien qu'on qu m'ait fait, et ça m'a touché. Euh, après, le plus sous-estimé, je ne saurais pas dire. Euh, je trouve que le, récemment, le, j'ai fait un entretien musical avec Fantôme euh, Déconnecté. Et pour les gens qui aiment la musique, qui aiment parler de musique, ouais, ça m'a fait un peu chier que ça ne dépasse pas les 5000 vues. Je trouve que ça méritait 10 000. Ouais, il y, y a un petit côté comme ça. Comme euh, la, la plupart des Vive l'Europe depuis a un an et demi. un quoi. million de vues. <laughs> ouais, voilà. Voilà. Donc, bah, je ne sais pas si j'ai répondu intégralement, mais euh, en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir entendu ça. Effectivement, oui, le, le premier générique était bien de, de Vive l'Europe. Ça reviendra peut-être un jour, hein, mais c'est juste que euh, je fais trop de choses en même temps. Et, euh, et voilà quoi. Et l'émission que tu regrettes le plus De l voilà. Voilà, ouais, <laughs> Toujours la vieille. Vraiment. ne méritait pas. Je vais peut-être même la retirer, l'émission. Elle ne mérite... mérite pas de figurer sur cette chaîne. Waouh. Salut, Daniel et Robin nous dit Taxi Driver. J'écoute les lives en différé dans les transports dîle de france et c'est ab... assez absurde, car je suis bien souvent entouré de 60 à 70% de non-blancs dans les wagons, pendant que j'entends Daniel être très taquin à leur égard. Parfois, j'éclate de rire et j'aimerais mettre le live sur Reparleur pour qu'ils sachent ce que l'on pense d'eux. Mais je risquerais de me faire Voilà. Penses-tu que l'islam sera interdit en France un jour ou réformé Bonne continuation. Ce rêve bleu, je, je n'y crois, crois pas, pas c'est merveilleux. merveilleux. Euh, il faut y croire, il faut y croire. Alors, en France, ça va être compliqué parce qu'il y en a déjà beaucoup, donc pour arriver à l'interdiction, c'est un changement total de paradigme. Ça demande une volonté extraordinaire, ça demande un engagement, ça demande du temps. Euh, je veux pas, je veux pas te mentir. Je pense qu'on est, est, on soyons sérieux. On est plus proche d'une France islamisée, et d'un scénario à la soumission, que d'un scénario de désislamisation de la France. En revanche, à l'échelle du monde blanc entier, que des décisions soient prises pour neutraliser l'immigration. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est, euh, on, on va faire une micro pause dans, dans la, dans la. Dans la FAQ pour lire un article que j'ai posté sur mon sur mon site. Je vais arriver, putain. C'était dur. Euh, je te l'envoie, je te le drop. Vingtième ouais. jour, tu trouves plus les <laughs> mots normaux, quoi. Genre euh, 20e bon jour. Jour, ah, Je bah, crois bah, qu'au contraire. Bah. Je, 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 te, je te laisse afficher ça. J'en ai pour deux minutes. Je vais, je vais prendre du, du coca et du, et du scotch. Euh, ah, il ouais, y a du coca. Et ouais, il y a du coca et il y a du whisky. Ah. Euh, voilà il y a même des glaçons. Il y a même des de Mais attends, la moi je vais, je vais aller le chercher. Bah vas-y attends, attends, toi. Euh... Attends. Ouais, alors juste bah, affiche-moi vite fait le, le début de l'article ouais. et moi je vais le lire en entier. Ouais, ouais, ouais. Ce que je crois déjà. C'est un article. Ouais, c'est un article que je t'ai envoyé sur le drop. Est-ce que je oh t'ai envoyé ouais. sur le bon drop Ouais, c'est bon. Voilà, donc je l'ai mis sur mon site. C'est à propos de l'immigration en euh, République tchèque. Évidemment, on n'arrive ouais. pas à l'interdiction de l'islam comme ça. Alors je tiens à dire que déjà il y a des pays euh, bah, où il y en a très peu et où il n'y a pas de raison qu'il y en ait beaucoup. Euh, par exemple, je ne vois pas du tout une installation de l'islam euh, en Roumanie. Il euh, y a une islamophobie dans la, dans la population euh, qui est vraiment euh, forte. D'ailleurs, ma femme m'a raconté une, une histoire absolument incroyable sur une collègue euh, à elle, qui... <laughs> C'est tellement fou que vous ne le croiriez pas, en fait. Euh... En fait, y a, y a... ma femme travaille dans un hôpital, mais elle n'est pas dans le service d'urgence. Et c'est juste pas là qu'elle travaille. Quoi. Et en fait, un, un patient s'est ramené qui n'était pas roumain. Et en fait, il se trouve que c'était euh, une femme juive, c'était israélienne. Il y a pas mal d'Israéliens en Roumanie parce que c'est pas très loin de, de là. Euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire Et donc, en fait, cette patiente est venue elle croyait qu'elle était au service urgence et elle ne parlait pas roumain. Et en fait, la, la collègue, de, la collègue de, de ma femme a demandé, euh, a demandé sa nationalité. Et, et donc, après, elle a dit euh, « Je suis juive, israélienne. » Elle a dit « Ok, euh, d'accord. » Alors, le, le service d'urgence, c'est là-bas et tout. Et après, ma femme m'a demandé « Mais pourquoi tu as demandé la nationalité enfin, ?»« Quel rapport avec la question qu'elle a posée ?» Et sa collègue a répondu « Mais parce qu'elle avait une tête d'Arabe et moi, j'avais pas envie de lui répondre si es une Arabe. » Interne en médecine en Roumanie, okay. quoi. <laughs> <laughs> il y a des pays qui soutiennent moins le Hamas que d'autres. Euh, la Roumanie est un pays assez, euh, assez euh, israël friendly. Euh, donc euh, surtout les meufs, j'ai remarqué. Donc, incroyable, mais vrai. Mais pourquoi je te dis ça Je te dis ça parce que voilà, euh, dans un premier temps, il y a des, des élites de pays d'Europe centrale et de l'est, parce que toutes les élites ne veulent pas le mal de leur de leur pe peuple. Euh, qui vont tout simplement, lorsqu'ils ont besoin ou lorsqu'ils veulent recourir à l'immigration, qui vont tout simplement pas avoir recours à des pays musulmans. Donc, par exemple, pour la République tchèque, la République tchèque a le même problème que tous les pays européens, c'est-à-dire des natalités et une jeunesse euh, qui fait... Tu peux afficher l'article. Hein, une, euh, 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 une, une jeunesse qui fait moins d'enfants que... On va dire n'importe quoi. J'ai une jeunesse qui fait moins d'enfants que les générations précédentes et une jeunesse qui a moins envie de travailler parce que bah, les tchèques... Ne sont plus pauvres comme il était à la sortie du communisme. Et donc, euh, les jeunes chèques, ce qu'on comprend parfaitement, ont des prétentions. Euh, voilà, ils ont des prétentions. Et euh, bah, que se passe-t-il bah, Il se passe que dans des domaines clés, et je ne parle pas de restauration, par exemple, hein, je parle du bâtiment, je parle, je parle de, de, de la construction de routes, euh, la construction d'hôpitaux, etc. Bah, en fait, il euh, y a un problème de main-d'œuvre. Et donc, regardez, je trouve ça remarquable. Pourquoi la République tchèque ne prend pas des en masse Ils ont des étudiants forcément du Maghreb ou d'Afrique, mais, mais pourquoi ils ne prennent pas en masse des Maghrébins Pourquoi ils ne prennent pas en masse des Irakiens, des Syriens Pourquoi bah, Peut-être parce qu'ils ont compris certaines choses. Voilà. Euh, donc, euh, oui, alors par rapport à l'anglais que je veux raconter, purement vrai, après, elle n'est pas représentative euh, de la Roumanie. Tout le monde n'est pas à vomir comme ça sur les Arabes, mais c'est un truc qui, qui est. Qui, qui ne peut pas exister en France, même si une femme consciemment ou inconsciemment euh, euh, discriminait une patiente en vertu de sa couleur de peau ou son origine, en fait, elle, elle n'irait l'avoir fait pour ça. Alors que là, elle, elle a dit ça à Julia en mode, bah, c'était une arabe, j'ai pas envie de l'aider quoi, qu'elle des démerde quoi. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors j'ai souvent répété, donc euh, observez bien que je, je suis constant là-dessus. Je trouve que les Roumains sont assez peu racistes. C'est-à-dire, il n'y a pas un rejet de l'autre en tant que l'autre, par exemple, du noir ou du chinois. Euh, ils sont même plutôt sympathiques. Euh, comme il n'y a pas énormément de noirs dans le pays, il y a même un côté, oh, c'est exotique, tiens, il y a un noir. Euh, en revanche, ils n'aiment pas l'islam en tant que projet religieux. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, parce qu'il y, y a des pays qui sont... Bah, si, je sais à quoi c'est dû, c'est historique. Ils ont, subi, euh, ils ont subi des invasions musulmanes, mais la France aussi. Sauf que nous, on a oublié... Euh, merci beaucoup un bon whisky et coca, merci merci. On a oublié ça et, euh, et eux ne l'ont pas oublié, mais c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Euh, et c'est pour ça qu'il y a très peu d'immigrés de travail en Roumanie qui viennent de pays musulmans. Euh, quand il faut piocher en dehors de l'Europe, ils vont piocher au Laos, au Vietnam, euh, au Sri Lanka. C'est pas terrible, mais bon, euh, voilà, euh, c'est pas des musulmans. Euh, éventuellement dans quelques pays africains, mais ils vont pas les chercher au Maghreb, quoi. Il y, a que la, il y a que la France, la Suisse et la Belgique qui font ces choix pourris. Alors, République tchèque, une immigration bien choisie pour combler le manque de main-d'œuvre. Regardez bien, c'est intéressant. À partir de janvier 2024, la Tchéquie pourra accueillir, pourrait, pourra accueillir 20 000 travailleurs étrangers supplémentaires, 20 000, hein, c'est pas, pas 200 millions, en provenance de pays européens et asiatiques. Ces recrutements viseront des professionnels tels que des experts en technologie de l'information, des médecins, des infirmiers, ainsi que des ouvriers spécialisés dans la construction et l'assemblage. Cette décision a été prise par le gouvernement après avoir été prouvée par une proposition du ministère de l'industrie et du commerce. Actuellement, environ 13 150 travailleurs étrangers, putain leur rêve quoi. Imaginez qu'on n'ait que 13 500 travailleurs noirs et arabes en France. Quoi. On en a 13 millions, bordel Sont autorisés à travailler en Tchéquie en excluant les réfugiés ukrainiens déjà employés dans le pays. Avant le début de la guerre en Ukraine, le quota annuel était de 55 000 demandes. Cette, euh, des demandes, hein, pas, des, pas forcément acceptées par le, par le pays. Quoi. Cette augmentation des quotas a été saluée par la Chambre de Commerce, évidemment, bien qu'elle ne résolve pas entièrement le problème structurel de la main-d'œuvre en République tchèque. Outre l'Ukraine, les programmes de migration économique, c'est là que ça devient intéressant, concernent principalement d'autres pays tels que les Philippines, la Mongolie. Alors là, voilà, en fait, les, les, les deux pays non blancs, c'est Philippines, Mongolie. Je peux vous parier un quart de couille, hein, courageux mais pas téméraire, qu'il n'y aura aucun problème d'insécurité lié à la présence de travailleurs étrangers en provenance de, de Philippines et de Mongolie. Voilà. Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Géorgie, Moldavie, Macédoine du Nord. Le ministre Joseph Sikel a souligné que, compte tenu de la situation démographique défavorable du pays, encore que la République tchèque n'est pas le pays qui fait le moins d'enfants en Europe, l'aide des travailleurs étrangers sera essentielle à long terme. Voilà, donc travailleurs étrangers euh, qui ont un visa de travail renouvelable une, deux, trois fois, pas de naturalisation, pas de regroupement familial, et tu vas piocher dans des pays qui ne sont pas musulmans. Ben voilà comment les pays qui n'ont pas fait le choix d'une migration d'installation musulmane s'en prémunissent. Euh, voilà, donc on en est à la question genre, est-ce que penses-tu que l'islam sera interdit un jour en France Ce sera probablement, probablement un des derniers pays où ça arrivera, mais je suis persuadé que des pays démocratiques, parce que les, les attentats, ça, ça va être une courbe ascendante, ne vont faire qu'augmenter dans les pays de l'Ouest euh, en voie de remplacement de population. Euh, certains pays prendront des mesures, mais ce sont des mesures qui seront d'abord des frontières externes. Des, là, en ce moment, euh, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, euh, les frontières ont été rétablies entre l'Italie et la Slovénie parce que depuis que la Croatie entre en Schengen, la Slovénie et l'Italie estiment qu'il y a trop de migrants qui arrivent depuis l'Est. Ne me demandez pas comment ils atterrissent en, en Croatie, mais évidemment les Croates après veulent s'en débarrasser. Et là, la Slovénie et l'Italie, hop, ont on remis à nouveau les frontières. Donc moi, je dirais que ce qui va disparaître avant l'euro, avant l'UE, euh, avant et surtout avant l'OTAN <laughs> c'est pas près de disparaître c'est euh, Schengen il voilà, y a un moment où Schengen ça ne tiendra plus il y a un moment où que ce soit la Pologne euh, la Hongrie ou la Roumanie vont dire non mais attendez euh, on se prend des attentats sur notre sol parce que vous n'êtes pas foutu de gérer vos, vos 15 millions de musulmans vous avez plus de musulmans qu'on a d'habitants euh, à un moment stop quoi. voilà de toute façon c'est soit le scénario de la protection bah, soit c'est l'invasion totale de l'Europe hein, qui est pas Alors, en laquelle je ne crois pas et que je, je n'espère pas mais qui n'est pas un scénario totalement improbable, malheureusement. Fin douloureuse, mais... Euh... Salut Daniel. Nous dit Français de sang. Yes. Est-ce que tu as prévu de faire du contenu avec Laurent Alexandre dans le futur mm -hmm. Oui, je lui ai demandé euh, s'il était d'accord pour un entretien... En fait, il est d'accord depuis longtemps. Hein. Pour un entretien... Oh, super bien dosé, là. Nickel, juste ce qu'il fallait. Euh, pour un entretien On sur bon son livre... Des bons dosages. <laughs> Ouais, euh, qu'est-ce que je disais? Voilà, pour le livre euh, la, ouais, la guerre des intelligences à l'heure de Tchad GPT, je lui ai proposé de faire un entretien avec lui là-dessus, mais qui sera, pas, qui sera très peu politique, qui sera un entretien vraiment euh, sur l'intelligence artificielle. Euh, oui, 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 donc moi j'ai une bonne entente avec lui, euh, c'est quelqu'un d'ouvert. Ouais, pourquoi pas. Ce que j'aimerais faire, ça aussi, avec Laurent Alexandre, c'est je pense que c'est indispensable, parce que mes vidéos sont vues par les nationaux. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de câbler les natio sur la science. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas tellement via Alexandre, Laurent Alexandre de trou trouver un autre public, parce que ce n'est pas trop comme ça que ça marche. Le public qui n'aime pas l'extrême droite, ce n'est pas parce qu'il y a Laurent Alexandre et Daniel Grasno qui vont regarder, je ne pense pas. Mais euh, en revanche, je pense qu'il y a un déficit de connaissances scientifiques dans le milieu de la droite, et j'aimerais combler ce déficit. Soit en m'essayant à une certaine vulgarisation dans les domaines de la science que je connais un peu, soit en faisant intervenir euh, des, des experts euh, extérieurs. Et ce que je voudrais absolument, c'est débunker ces deux grosses merdes que sont Jean-Claude Jancovici et Aurélien Barrault. Je pense qu'il faut dégommer ces mecs. Il faut dégommer ces mecs qui font un mal fou à la jeunesse blanche et à des penseurs, euh, notamment comme Rochdy, qui sont des, des auditeurs, alors peut-être pas d'Aurélien de, de Barrault, mais de Jancovici. Qui raconte énormément de conneries. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un travail à faire, effectivement. Steph, je crois. Ouais. Je crois que c'est Steph, nous dit Ça m'aurait fait chier de ne pas avoir participé. 30 bah balles. Un... Très bien. C'est beau. C'est beau. J'adore. Euh, quelle est ton opinion sur Jules Verne nous demande un anonyme. Bah, Jules Verne, c'est euh, magnifique. Enfin, c'est tout simplement. Euh, c'est l'évasion pure. C'est. Euh... Le, le génie imaginatif, le, le génie français, enfin c'est... Voilà, si, si je devais ouvrir un café, euh, je l'appellerais le Chopin Café ou le Jules Verne, quoi. C'est vraiment... Euh... Non, pour moi, c'est le sommet de la culture euh, littéraire, euh, d'évasion. Souvent, je conseille aux gens qui sont en des de malheur et qui, qui sont plombés par l'actualité, on les tous à un moment ou à un autre... Euh, de, de, de se plonger comme ça dans, dans des auteurs qui te font euh, visiter d'autres mondes. Alors c'est vrai que Jules Verne, il a un côté un peu daté parce qu'il y a des choses scientifiques dont Jules Verne va parler dans ses romans qui en fait s'avèrent être imprécises, voire fausses et impossibles et on le sait aujourd'hui. Mais, mais bon, euh, si tu cette ouverture qui consiste à, à te dire pendant la lecture que ça a été écrit il euh, bah, y a euh, plus de 100 ans... Eh bien, bah, t'acceptes, tu vois, t'acceptes ça et ça devient merveilleux. Enfin, moi, je me souviens encore avec une émotion la lecture de Voyage au centre de la Terre quand j'étais collégien. Euh, voilà, le tour du monde en 80 jours, euh, 20 milieux sous les mers. Euh. Non, non, bah, un génie, quoi. Voilà, un génie et une fierté, de, de, un monument de la culture française, bien sûr. J'adore. Euh, bonsoir, messieurs, nous dit François Raffin. Ouais. Euh, un ultime don pour porter mon total final à 800 cents euros. Oui. Qui était donc à 600 Ouais, exact, exact. Il fait donc 200 cents euros de François Raffin, Bravo. en espérant que cela participe à atteindre et dépasser les trente mille. Oh là, je crois qu'on est. Et au-delà au ouais. même. <laughs> euh, Daniel, tu avais un projet de scénario pour un film de vengeance de droite, il me ouais. semble. Un rapport avec la cagnotte, bise euh, à tous. non. Non, parce que. J'ai mis ce projet de côté, j'ai pas écrit le scénario, hein. j'ai mis ce projet de côté parce que c'est infilmable, si tu veux quoi. C'est-à-dire, tu, tu, tu peux pas mettre un. Je peux pas être porteur de ce projet. En fait, je peux pas être porteur de ce projet parce que je peux pas faire un film de vengeance droit tard, euh, de riposte euh, terroriste, à un attentat des terroristes. Euh, le côté distance fictionnelle ne marchera pas et ça mettra en danger mon travail euh, ce que j'essaye de construire euh, ma communauté Donc euh, voilà. mais par contre euh, je suis toujours envahi par des idées de cinéma et là ben là clairement je vous ai promis que si on a passé les 25 000 qu'on arrive jusqu'à 30 000 je, 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 dans l'année je lancerai un, la production d'un court métrage bah ben là du coup je vais le faire hein. ça va me remettre aux manettes, ça fait 10-12 ans que j'ai pas fait ça mais ça me, ça me démange trop euh, je, je ne sais pas à quoi m'attendre. Hein. Peut-être que je suis un, un Ed Wood moderne et que ça sera de la merde, mais euh, au moins je, je vais réaliser un peu mais revenir un peu à mes premiers rêves. Euh, voilà ce que je peux te dire. Mais ça sera pas. En fait, je ne veux pas faire d'oeuvre trop directement politique. Je veux faire un film qui soit bien. Je veux, je veux faire des, des courts-métrages qui soient bien. Que les gens regardent et se disent Putain, c'était un, un moment agréable, je vais m'en rappeler. Euh, C'est ça que je peux faire. Euh, et, et si message politique il y a, il sera, il sera cryptique. Les, les meilleures œuvres sont, sont comme ça en fait, ne sont pas des œuvres à message. Bon courage pour ton projet, nous dit Pierre P. Merci Pierre, ça fait plaisir. Benjamin Pavillard nous dit bonsoir, comment vont tes enfants, est-ce que l'école se passe bien ah, C'est gentil. Euh, bah alors il y a qu'un de mes deux enfants qui va à l'école, c'est ma fille, ça se passe bien, elle est dans les premières de la classe, elle est toute contente. Euh, mais c'est aussi parce qu'on l'avait bien appris à lire, à compter avant, donc là elle est dans une phase où elle, elle s'ennuie un peu parce qu'elle elle sait déjà ce qu'elle ce qu est censée apprendre maintenant mais c'est très intéressant euh, je, je vous dirais euh, ce que euh, en, en fait je, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer l'emploi du temps de ma fille et euh, vous allez voir c'est étonnant parce qu'elle a des matières qu'on n'a pas en France par exemple elle a une matière qui ressemble à ce qu'on avait autrefois en France qui s'appelait morale, c'est un truc que j'ai pas connu, euh, mais dans les années 40-50 il y avait des cours de morale qui était issu d'ailleurs de la morale religieuse en général. Hein. Et nous, l'équivalent de la morale, je dirais, c'était l'éducation civique. Sauf qu'ils en ont beaucoup. Et en fait, ils appellent ça maintenant euh, développement personnel. Au début, j'ai vu ça, je fais quoi Ma fille a des, a des cours de développement personnel à 6 ans. Mais en fait, c'est des, des cours de, de vie en société roumaine. Je trouve ça génial, quoi. Genre, comment on se comporte avec les gens, comment. Euh je sais pas euh, comme, comment être en fait, comment être un bon enfant, je trouve ça super. Donc en fait, c'est l'équivalent des cours de morale. Elle a deux trois fois par semaine, elle a un cours par semaine de religion, un cours par semaine d'anglais, et sinon, euh, maths, euh, euh, sciences naturelles, euh, roumain bien sûr, langue roumaine. Euh, ils ont pas encore histoire, je crois. Ils ont pas histoire, ils ont religion avant d'avoir histoire, c'est marrant ça. Euh, voilà, donc, donc ça se passe bien. Mais en Roumanie, le système c'est que les enfants vont à l'école que le matin. L'école n'est obligatoire que le matin. Après, certains laissent en programme long, mais nous, on vient la chercher. Enfin, moi, je vais chercher ma fille à l'école tous les matins à 11h45. Voilà, et mon fils, euh, en semaine, il reste avec la nounou le matin, et le week-end, on s'en occupe nous. Et tout va bien. Tout va bien. Et mon fils parle de mieux en français. Et, euh, il est très chou, très affectueux. Euh, mon, fi mon fils est très doux, très obéissant, plus que ma fille. Euh, je suis dans une phase de très bonne relation avec mes enfants. C'est très agréable. J'espère que ça va durer. On a 50 euros d'un de, de, anonyme. Non, de Jessica. Oh, merci. Juste avec un smiley, pouce en l'air. D'ailleurs, c'est gratuit d'en mettre sur YouTube. Oui. On en profite. 850 visionnages en cours. S'il pouvait y avoir 850 pouces, on serait ouais. ravis. Exact. Et euh, Adrien Laurent. Ah. Adrien Laurent nous dit bonsoir, Daniel. Hormis tes parents, tu parles rarement de ta famille. As-tu des frères, des sœurs, des grands-parents, cousins, oncles, proches, etc. Quelle est ta relation avec eux <laughs> Savent-ils ce que tu fais Et si oui, ont-ils coupé les ponts Regardent-ils parfois tes émissions Ou s'en ils allègrement les couilles Oh écoute, c'est une question un peu intime, tu vois. C'est pas que, que j'ai des choses à préserver, c'est que je, je vois pas trop l'intérêt d'en parler publiquement. Mais euh, bah, j'ai une sœur, ça je l'ai déjà dit. Euh, en fait, c'est ma demi-sœur. Euh, c'est la, la fille de ma mère, mais, euh, mais d'une précédente union et euh, je m'entends relativement bien avec ma sœur même si on n'a pas les mêmes idées politiques ma sœur a deux enfants en blanc elle vit en Suisse euh, voilà j'ai pas de frère j'ai des oncles des tantes euh, mais, euh, mais je crois bien qu'on est à peu près tous à droite sauf ma sœur en fait autant que je me souvienne et, et ma sœur commence à s'inquiéter un peu de la, de la sécurité en France donc euh, je vois certaines évolutions après, après c'est des choses c'est des processus qui sont longs euh, mais, mais comme on se voit pas souvent dans l'année, il n'y a pas de friction, euh, euh, on arrive à se tolérer l'un l'autre. Donc euh, j'ai plutôt une bonne relation avec ma famille de manière générale. Euh, voilà, euh, mon père était de droite, ma mère aussi. Euh, voilà quoi, mais, mais de droite, je veux dire, pas politisé. Hein, mes parents n'étaient pas lecteurs euh, de Guillaume Faye, quoi. Euh, je veux dire, ils étaient euh, de droite pop populaux, quoi. Voilà, hein, tout simplement. Euh. Euh, C'est-à-dire quand tu affrontes le quotidien en France, comment ne pas avoir des idées de droite sur sur des questions évidentes, voilà. Donc euh, non, j'ai plutôt. Une... Je parle pas de ma... Je parle peu de ma famille euh, en dehors de mes parents parce que bah, je les fréquente moins. On fréquente général on fréquente plus ses parents, euh, mais parce qu'il y a rien à en dire aussi. Il y a rien de. Il y a rien d'extraordinaire, voilà. Alors que j'écoutais Rojdi qui disait que pour avoir des beaux blancs. En bonne santé, il faut aller dans des réunions écolos, nous dit Adrien Esqueré. Ouais. Par hasard, je suis tombé sur la photo d'un ancien camarade de classe belge devenu écolo militant, le sourire forcé et un mug pro Palestine, le regard hanté typique oh. d'un dépressif, My God. mais surtout un gros coup oh. de vieux. Et le seul commentaire sur la photo, celui d'un Sénégalais qui se fout de sa gueule. Ah bah génial, tout est dit. <laughs> la quadrature du cercle. Non, bah, c'est. C'est délirant, quoi. Comment en 2023 on peut soutenir les Palestiniens après toutes les souffrances infligées par les musulmans aux Français enfin, ça, me, ça me dépasse. Dominique H. Dominique, nique, nique. <laughs> Je l'avais en tête, bordel. <laughs> Ma contribution au livre blanc sans Karim ou Fatoumata en caution antiraciste Daniel, continue tes lives cinéma je ne les regarde pas toujours ah bah mais continue <laughs> j'adore ce que tu fais mais je regarde pas je déteste mais c'est génial euh, ouais, je détesté. <laughs> euh, Daniel continue tes lives cinéma je ne les regarde pas toujours mais je consulte les films en description mm -hmm. et j'ai ainsi découvert La Chasse avec Mats Mikkelsen j'ai passé un bon moment grâce à toi merci car il n'y a pas que la politique dans la vie et voilà un film original c'est vrai que j'en ai parlé dans un live du cinéma de cette série Espoir je crois que c'était l'épisode euh, 10 D'ailleurs, il y a un sommaire dans cette émission de Ça, cinéma. Ça te mais... rappelle les épisodes. Ouais. <laughs> à la je, minute 57. Vers la fin de l'émission. Voilà. Ah ouais, voilà. Donc, de toute façon, j'ai fait un. Enfin, so... La machine. J'ai fait un sommaire euh, donc euh, pour s'y retrouver. Euh, voilà. Donc, vous avez un, un sommaire dans le lecteur euh, YouTube et vous pouvez euh, aller vers le film qui vous intéresse. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, il y a un mec qui m'a dit a... Tu vois, des fois, j'ai je... vu le dernier duel du sacré de Scott. Le, 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 le film, je rappelle vite fait, où en fait il y a une femme qui se fait violer. Ça se passe au Moyen-Âge en France. Et euh, en fait, toute la question du film est de savoir si elle a vraiment été violée ou si elle invente cette histoire. Moi, je trouve que c'est un très, très bon film en termes de mise en scène et que alors, la construction, ça rappelait un peu le Shawn de Curiosa voix C'est-à-dire que en fait, ça raconte la même histoire de plusieurs points de vue différents. Enfin, je trouvais ça assez brillant comme film, quoique un peu lent parfois. Et il y a un mec en commentaire qui m'a refait voir le, le film de une autre couleur. Il me dit Mais t'as rien compris au film En fait, c'est un film woke. Euh, bah, vous, voyez que dans, vous voyez que dans le sens où euh, ça épouse complètement le point de vue de la femme et euh, ça, ça pointe du doigt les gens qui ne croient pas une femme sur parole juste parce que c'est une femme. Et c'est vrai qu'après, quand, quand il m'a dit ça, j'ai revu le film un peu autrement dans ma tête. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que le, le film te pousse à épouser le point de vue de la femme, mais je sais pas, moi j'ai pas vu une intention hostile là-dedans. Donc je lui, ai, je lui ai répondu, écoute, t'as peut-être raison, t'as peut-être tort, mais moi ça m'a pas marqué particulièrement. Pourquoi pas, tu vois Et il m'a répondu, non, non, mais j'insiste. Le réalisateur a dit que c'était un film féministe. Euh, Mademoiselle a dit que c'était un film féministe. L'actrice principale a dit que c'était un film féministe. Et Franchement, j'étais passé au travers complètement de ce, pardon, de ce, de cette interprétation. Euh, peut-être, peut-être, euh, ça m'a pas marqué particulièrement. Mais au niveau de la chasse, euh, bah oui, voilà, voilà le genre de film que j'aimerais faire, parce que. Ce que j'ai aimé, dans la chasse, je me dis, voilà un film dont j'ai jamais eu l'idée. Vraiment. Euh, faire un film sur un mec qui est accusé à tort de pédophilie. Putain, mais c'est génial, quoi. Enfin, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet de société. C'est un vrai sujet psychologiquement intéressant. Euh, c'est profond. C'est bien joué. Euh, c'est un film qui parle de vraies choses. C'est pas un film qui. C'est pas euh, Spider-Man, le retour de la vengeance, de la furie. Euh, putain, j'ai vu le film. C'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais. Mais tu vois, putain, c'est un bon film, quoi. Et, et, et voilà, moi, si je devais un jour devenir réalisateur, m m mon ambition, ce serait juste faire des bons films. Euh, faire un bon film qu'un cinéphile pourra apprécier, tu sais, comme un bon vin, genre, il est bon ce vin, il est bon ce film. Voilà, je n'ai pas la prétention d'être Kubrick ou, ou quoi que ce soit, mais, euh, mais voilà, c'est ça qu'on veut voir, quoi. On veut voir des films comme ça qui te bousculent, euh, qui sont bien cadrés, bien filmés, bien joués. Euh, qui, te, qui, te, qui, te, qui te font réfléchir un petit peu sans être, sans être des films d'auteur chiants, euh, ouais voilà quoi. Donc c'est pour ça que quand je vois des films comme ça, je vous les conseille. Blue Jay, le film Blue Jay va un peu dans un peu ce même genre, voilà. Un film qui, qui, qui raconte pas grand chose mais qui le raconte bien. Euh, et ça c'est le genre de film que, que j'aimerais faire. Okay. Okay. ok. Ça se termine comme ça. <rire> <Okay>. <rire> euh, euh, espère merci. Espère que tes films se terminent pas comme ça. Hein. Euh, ouais, ouais enfin euh, À la soprano en fait. Ouais. Ah, ah merde, j'ai spoilé. Euh, ah, j'ai rien euh, spoilé en fait. Il y a un film de Fassbinder qui se termine comme ça. C'est la plus grosse arnaque du cinéma. Alors, je me souviens... Je sais plus quel film c'est. Euh, je crois que c'est Mama Cluster. Mama Cluster, ça va aussi. Elle attends je vais regarder, je vais, je vais te dire ça. Attends. Ah putain. Fassbinder. Monsieur, trois films par an j'ai trouvé ça! Ah bah, FAQ de 6 heures, je prends mon temps. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Quoi, à sa gueule? Non, sa non, gueule non, non. Que je, je, ah je, oui, je reviens Je préviens, je préviens. Non, mais tu peux te dépêcher aussi. Hein. Ah, ferme-la. <laughs> le secret de Mais Vérind... Mettons. c'est l'histoire -ce Filmographie comme réalisateur. Ah, ça s'arrête en 82? Il est mort en 82? Mais attends, c'est quoi ces conneries? Shame? Euh, non, non, non. Non, On non, non bah, le, non s'attend. Rainer Werner Fassbinder. Pas le... Le réalisateur allemand. Ancien. Qui est mort... Euh, qui est mort à 37 ans, d'ailleurs. Alors... Maman Custer s'en va au ciel. C'est ça. Maman Custer... Drôle de titre, hein. Maman Custer s'en va au ciel. Je crois pas m'être trompé. Non, vous, vous confondez avec l'autre. Un autre réal qui a le même euh, patronyme. Et en fait, à la fin de ce film... Pourquoi il a fait ça Alors, est-ce que c'était un manque de budget ou est-ce que c'était juste une farce de réalisateur C'est qu'en fait, l'image se fige et en fait, il te raconte la fin euh, comme, comme dans un scénario. Euh, il te dit, en fait, euh, euh, c'est peut-être un autre film Furious*, mais je crois que c'est celui-là. Euh, il te dit, euh, plan sur... Euh, c'est écrit à l'écran, plan ah, ouais, sur ma main, okay. euh, contre-champ sur euh, truc, budget, euh, elle fait ceci, quoi. il fait cela, fin. Et c'est l'argent. Hein <laughs> C'est des trucs que tu vas plus dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est le moment où le réalisateur... C'est un peu comme le générique de début du mépris de Godard où c'est Godard qui parle. Le film a été réalisé par Jean-Luc Godard. Avec Brigitte Bardot et tout. Putain, à une époque on pouvait faire des trucs au cinéma. Oui, ils confondent avec Michael Fassbender. Rien à voir. Bonsoir Daniel et Robin. Eh bien, quelle aventure ce mois de live, c'était vraiment génial, merci encore pour tout. Ma première question, nous demande Sophie. Oui. Ma première question, Daniel, peux-tu nous conseiller cinq livres politiques à lire absolument Mais il n'y a pas d'autres questions. Il euh... y a juste ma première question et il n'y a rien d'autre. D'accord, ok. Oui, je précise, il y a des gens qui n'aiment pas me voir en chaussettes. Oui, euh, en fait, il faudrait que je fasse un plan plus près de moi pour vous cacher que je suis en chaussettes. Pourquoi je suis en chaussettes Quand je fais des émissions longues et que je mets des chaussures, en fait, j'ai les, les jambes qui enflent. Et pourquoi choisir l'inconfort ça n'a pas d'importance. C'est euh, une question d'apparence. Est-ce est est si vra est vraiment si grave que ça Je ne sais pas si ça l'est. Il faudra peut-être faire un sondage. Euh, Dois-je cacher le fait que je fais un live en chaussettes Si vous pensez que c'est le cas, je veux bien me soumettre à, à l'opinion générale. Alors, Moi, je suis bien en côte de maille avec un, bah un oui. casque et des cornes. Rien en dessous, par contre, c'est bizarre. J'entends tes couilles qui. Est... <laughs> qui... Euh, je, vais, je vais les calmer. Euh, que disais ah, C'est toujours difficile, c'est. Isoler cinq livres politiques. Euh... Ah, Laisse-moi réfléchir. Parce que je... sinon, je... cette question m'a déjà été posée et après, j'ai tendance à toujours donner les mêmes. Il y a un bouquin qui Alors, un bouquin de Gamefy qui est super c'est L'Occident comme déclin non pas le déclin de l'occident alors ce qui est incroyable c'est que je suis en désaccord avec la thèse de faille dans le livre mais elle est fascinante et la thèse de faille dans le livre c'est que ce n'est pas que l'occident est un déclin c'est que l'occident apporte le déclin c'est à dire que l'occident dans sa version 20e siècle et 21e siècle contamine le monde avec le cosmopolitisme en gros en gros hein, euh, c'est évidemment bien plus que ça le livre et c'est un, un livre qui a une profondeur intellectuelle incroyable, qui, qui, qui a même plein d'années. Il y a plein de moments où je me suis dit, putain, je ne vais jamais considérer la question comme ça. Ça, ça a l'air si vrai que je crois bien que c'est vrai. Il y, a, il y a plein de moments où j'ai été séduit par les positions de Faye, même si je pense que je pense qu'il se trompe quand même, mais ce serait, ce serait trop difficile de vous dire pourquoi, quelle est moi ma... Mais, mais c'est un livre.. D'ailleurs, euh, j'ai oublié de vous dire, euh, ou je lui peut-être dit, euh, je m'en excuse si c'est le cas, je vais transformer ma chaîne Vive l'Europe. Où je vais, alors, je vais faire des lives de cinéma plus souvent sur la chaîne Vive l'Europe, mais aussi, je vais... Euh, et ça, ça intéressera plus les nationaux. Je vais faire des revues de livres. Voilà. Des revues de livres qui sortent aujourd'hui. Par exemple, mettons, le livre d'Oberton, j'ai prévu de l'acheter quand je vais aller en France. Je vais en faire une revue. Euh, je pense que les gens m'apprécient un peu dans, dans ce domaine-là. Ça peut être intéressant. Ça vous permet d'apprendre le contenu des livres sans les lire. Je sais que tout le monde n'a pas le temps que j'ai. Quelque part, je suis, je suis payé aussi par vos dons pour lire ces livres, pour me cultiver et pour... Euh, euh, mûrir comme ça ma réflexion nationaliste. Donc, euh, qu'est-ce que je disais donc euh, je, je ferai peut-être une vidéo sur l'Occident comme des clins Vraiment, c'est un, un, un bouquin de failles euh, que j'avais lu il y a longtemps, mais que j'étais passé complètement au travers. Et je l'ai relu récemment. Euh, D'ailleurs, Egonon a fait une super vidéo là-dessus. Euh, parce que je me suis dit, je, je critique les décadentistes. Et en fait, euh, Guillaume Fay a écrit un, un bouquin qui s'appelle L'Occident comme des clins Et je l'ai lu, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et je trouvais ça brillantissime. Euh, je citerai un autre livre de Faye, alors ça fait un peu le, la groupie de Faye, mais bon, euh, c'est Sexe et Dévoiement. C'est un super livre sur les, les relations hommes-femmes, sur le progressisme, sur le féminisme. Euh, pareil, intelligent, drôle, sarcastique. Euh, c'est un livre qui est peu cité de Guillaume Faye, donc Sex et Dévoiement, c'est vraiment un super euh, bouquin. Je le cite souvent, mais pour moi, c'est une référence intellectuelle. Euh, c'est l'autre tiers-mondisme de Philippe Bayer. D'ailleurs, je le vends sur ma boutique. Euh, donc, c'est pas moi qui l'édite, mais, mais je le vends. C'est quoi ta euh, boutique euh, une question. DanielCroiseau.com slash boutique, tout simplement. Voilà. Voilà, ben voilà, voilà, ça c'est intelligent. Et page 2 de cette, de cette boutique, il y a, c'est le dernier bouquin que c'est pas pourquoi, L'autre tiersmondisme des origines à l'islamisme radical. Un bouquin plein d'arguments contre la droite euh, euh, contre la droite tiers -mondiste. En fait, c'est un, un antidote au tiers je, je, je suis persuadé que le tiers est la maladie mentale à la source de toutes les incapacités occidentales à créer une philosophie de droite positive qui donne envie aux jeunes qu'on la suive. Donc j'ai cité L'Occident comme déclin de Guillaume Faye, j'ai cité Le sexe et le dévoiement, L'autre tiers-mondisme de Philippe Baillet. Il euh, y en a un autre euh, que je conseillerais. Bah, là, là c'est un livre de Laurent Alexandre, c'est « Jouissez jeunesse ». En fait, « Jouissez jeunesse », c'est un, un livre rayonnant d'optimisme et qui donne des perspectives sur ce que, peut, ce que sera probablement et ce que peut être le futur de l'humanité. Euh, exemple à la pluie, à la pluie, c'est un, 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 un antidote parfait euh, aux positions antimodernes. Anti voilà, J'invite... Euh, Julien Roche dit à lire plus de, de livres de Laurent Alexandre ou des gens de cette mouvance-là. Euh, voilà, c'est pas un livre nationaliste, mais c'est un livre qui, qui donne envie d'aller vers le futur et, et qui est très convaincant par, par bien des aspects. Et alors, un dernier, ce que je pourrais citer Peut-être plutôt un ouvrage littéraire. Euh, Laisse-moi un peu réfléchir. Vas-y, prends ton temps. On est là toute la nuit. Le désespéré de Léon Blois pour le style, voilà. Je, 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 là pour le coup, j'ai pas, pas la ligne de Léon Blois. Euh, je suis très me sens très dans la ligne cette ligne. C'est quoi la ligne Léon Blois Pff, Très vieille droite. Tu sais, bah, Léon Blois, c'est le mec. Il y a un siècle qui trouvait que son siècle c'était le pire. Tu vois ce que je veux dire non, En gros, euh, la ligne Hein, ouais, ouais, voilà. Non, mais c'était <laughs> le voilà, c'est faire trop d'honneur à Roger -Di De dire que c'était le de l'époque. Mais, mais, mais je veux dire, il, il, voilà. Un mec qui n'aimait pas son époque, un très bon pamphlétaire. voilà. Je, je, trouve pas, je trouve que Blois écrit mieux que Céline en réalité. Euh, mais, mais, mais Céline a, a plus marqué l'esprit parce que déjà, c'est son retour. Mais le, le professeur de Céline, c'est qu'il a connu la guerre, il en parle, il a été médecin de guerre. Donc, donc les livres de Céline sont chargés de vérité, d'authenticité. Enfin, c'est des livres brûlants vraiment. Quoi. Et puis il a introduit ce langage parlé dans la littérature et il l'a fait super bien, surtout dans ses premiers livres. Je ne suis pas fan de la fin de carrière de, de Louis Ferdinand Céline. Mais Léon Blois, comme rebatté, c'est des écrivains, je dirais, à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a une fluidité. Vous les lisez, il y a des moments, des moments, vous lisez cinq pages, vous êtes en apnée littéraire. Vous dites, mais comment on peut écrire aussi bien C'est juste merveilleux. Euh, euh... Et puis alors, la liberté de ton, j'en parle même pas. C'est-à-dire que, autant que je me souvienne, Le Désespéré n'est pas particulièrement antisémite, par exemple, comme livre. C'est des livres qui sont, c'est pas des livres interdits, hein, c'est des livres que vous pouvez trouver même euh, pas à la FNAC, mais à Gilbert Joseph sans problème. Et puis tu vas tomber sur un passage où il va te décrire un juif, euh, genre, il décrit un juif qui s'appelle Nathan et qui est très bon le cliché sur le juif, tu vois, qui est euh, très euh, avare, etc. Et puis en fait il fait un pamphlet d'une page sur les juifs, c'est le tout le putain antisémite que j'ai lu de ma vie. Et puis après il passe à autre chose comme s'il avait rien dit quoi. Et toi, tu es là oh, Ok, euh, moi je suis en 2023, euh, qu'est-ce que je suis censé faire euh, Est-ce que j'ai est le droit de rire à cet extrait <laughs> Missile, hop Autre chose. Non, mais ouais, genre, à un moment donné, il, dans, dans le livre, il dit, euh, dans le bouquin, il dit, euh, mais quand on voit des mecs comme ça, comme ce Nathan, etc., vous lui donnez un denier, il lèche le sol, etc., voilà. et puis il finit le pamphlet, il dit à tel point qu'on se demande pourquoi Dieu tient à la perpétuité d'une telle vermine oh, oh. <laughs> Oh putain. <laughs> et es là dire, oh putain, ouais. C'est pour ça les mecs, des euh, mecs qui... Pareil, il faut vivre avec son époque. Les mecs qui disent, ouais, les gens d'aujourd'hui n'ont qu'un courage. Ils dénoncent pas, euh, comment dirais-je, le, le lobby euh, juif mondialiste, etc. Et, enfin, rendez-vous compte, on a une époque où, même en ne disant pas le mot, quand on suggère qu'il y a un lobby comme euh, le mec euh, qui n'a pas osé dire juif et qui a eu affaire au mec, il disait qui Mais qui Vous pensez à qui le mec qui s'est fait raccrocher enfin qui s'est fait éjecter du plateau il a quasiment rien dit alors que au, il à il la fin il a rien dit il a rien dit à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle enfin c'était juste légal d'être euh, raciste antisémite c'était même pas interdit quoi donc euh, donc évidemment ça offrait plus de liberté littéraire on va dire <laughs> mais c'est même pas le côté Haha, je suis antisémite ça me fait rire c'est même pas ça c'est le souffle de liberté est suffocant bah, tu tu lis ça euh... <laughs> même quand, quand Céline alors Céline évidemment était antisémite mais, mais on ne te, on te parle jamais des moments où Céline parle des, des africains enfin <laughs> des défonce c'est tellement il euh, y a un niveau de mépris qui est juste inconcevable pour nous et, et euh, c'est drôle à lire euh, Peux-tu nous partager ton top 3 de films que tu considères personnellement comme des chefs-d'oeuvre J'ai appris tellement. ta grande passion pour le cinéma une passion que tu as mentionné au cours d'Espoir merci nous dit Barouji. Oui, alors quelqu'un nous dit euh, dans le chat, assez, assez, euh, justement dans le chat, parle de salut par les juifs. En fait, il, il, Blois est antisémite sans lettres. C'est compliqué. C'est toujours cette, cette vision, euh, c'est toujours ce rapport. Catholique aux juifs, c'est-à-dire ils ont tué le Christ, mais en même temps, on est quand même un peu issu. Enfin, euh, je veux dire, avant, avant le Nouveau Testament, il y a quand même l'ancien, donc on est quand même un petit peu cousin spirituel. C'est pas clair, en fait, la relation et les troubles. Mais là, je parlais vraiment de style, quoi. Je parlais vraiment de style. Euh, écoute, je vais citer des films que je cite souvent. Euh, y a trois films. Voilà, je vais citer trois films qui, d'ailleurs, sont sortis dans, dans les années 70, les trois. Et c'est typiquement le genre de film qu'on ne voit plus. Barry Lyndon de Stanley Kubrick, Ludwig, aussi connu en français, Le Crépuscule des Dieux de Luchino Visconti, Solaris d'Andrei Tarkovsky. Voilà des, des, des chefs-d'œuvre, des films qui prennent leur temps, des films où tous les plans sont beaux, des films profonds, des films, euh, des, des œuvres d'art. Voilà, comme, comme je n'en vois que trop peu aujourd'hui au cinéma. Donc si vous voulez euh, aller à. Voilà, voilà, bah voilà, voilà certains des films que je place dans mon panthéon euh, personnel. Euh, pour contribuer à ce bouquet final, j'ai regardé Dédé. tous les lives. Merci Dani, Nicolas B. Je sais même pas comment vous avez, vous prenez le temps de regarder tous ces lives vous-même parce que hier le live de 5 heures, c'était même moi, j'étais, j'avais honte. Même moi je regardais pas. <laughs> c'était pas moi en fait, hein. c'était une IA qui parlait à ma place. Euh... Exactement. Voilà. Alors, on en profite pour vous dire que euh, pour que ce live soit une performance jusqu'au bout et pour l'encourager, vous pouvez... Là, en fait, on répond aux questions des donateurs euh, qui ont été ah bon posées euh, sur YouTube, notamment. D'où viens-je Voilà. Euh, et via le site DanielComarsano.com, non danielconvarsano.fr. Ah le mec Ah, je ah, suis allez. stupide. Vous avez un lien dans le chat vers ce, ce site, ainsi qu'en description de la vidéo. Vous pouvez. Là, là, on joue, hein. on s'amuse. C'est le dernier jour, c'est le festival, mais si vous voulez que ça dure six heures, il faut nous alimenter pendant 6 heures, mais ça peut être un euro. Hein. Là, vous êtes 800 spectateurs, vous pouvez faire des, des dons d'un ou deux ou trois euros. L'essentiel, c'est qu'on ait. Ah bah évidemment, si c'est plus, tant mieux. Mais, mais qu'en en fait, on, on joue le jeu jusqu'au bout et qu'on soit motivé, bien sûr. Euh, J'en profite, tiens, pour te faire faire une. Enfin, faire une petite pause mentale. Je vais répondre à une question que m'a posée Lou. Et en fait, il m'a posé cette question dans un live au tout début de la série et j'ai oublié d'y répondre. Et j'y pense maintenant. Et la question de Lou, c'était par rapport à... qui m'avait fait un don de, de 200 euros, je le remercie d'ailleurs. Euh, un abonné des Live, un fidèle parmi les fidèles. Et il m'a dit, Daniel, est-ce que... En fait, il me posait une question sur l'avortement et plus exactement sur l'utilisation systématique, systématique de la capote. Et il me disait, est-ce que tu... Ne... Cette question était vraiment taillée pour moi. Est-ce que tu ne... tu ne penses pas que le tout-capote... Euh, dissuade aussi les gens de faire des enfants sachant qu'un un enfant peut être aussi un accident heureux. Bah écoute Lou euh, je suis étonné que tu me poses la question de cette manière parce que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, c'est à dire que je suis tout à fait d'accord avec toi je, je, crois que, je crois que quand il y a de l'affection entre un partenaire entre une femme et un homme euh, il faut faire le, le, parfois le pari du, du hasard et que et qu avoir un enfant n'est jamais une mauvaise chose c'est ce que je crois, après c'est vrai qu'il vaut mieux attendre, on va dire il y a mille moyens, même sans utiliser de capote, de faire en sorte qu'il qu n'y ait pas de naissance c'est pas des moyens à 100% fiables mais enfin, je veux dire si tu ne viens pas à l'intérieur de la femme et si tu fais ça en dehors de ces périodes de fécondation, bon, le risque d'avoir un enfant il est quand même super limité et aujourd'hui les femmes ont des moyens de savoir si elles sont en période d'ovulation ou pas, donc il y a plein de moyens non contraceptifs euh, de ne pas faire d'enfant quand tu n'en veux pas quand il arrive dans une relation qui a 6 mois et 1 an, bah oui, moi, je trouve que les gens se posent trop... Les Blancs se posent trop de questions pour avoir des enfants. Là, évidemment, je parle des Blancs qui sont pas contre l'idée, a priori, d'avoir des enfants. Là, c'est encore autre chose. Mais euh, t'as parlé de Blancs qui se disent ouais, « je sais pas, j'hésite et tout, machin, mais... » Putain, mais en fait, avant, on n'utilisait pas de capote, on baisait notre meuf, et puis il y a un moment, on faisait un enfant, et puis, et puis on le gardait parce que les enfants se gardaient, et puis voilà comment on en faisait trois, quoi. On a l'impression que maintenant, c'est... Les plus difficiles, vous savez, ce truc de... cette phrase de la Bible, là. Les plus difficiles pour un blanc de faire un enfant que pour un riche de rentrer dans le trou d'une aiguille, là. Merde, quoi, c'est... C'est euh, la chose la plus simple du monde. Ken euh, euh, ta meuf sans capote, merde, quoi, ça me ça me choque ça me choque moi ça me choque que des gens en couple utilisent le préservatif je comprends pas On même pas comment c'est possible je trouve, pour un homme je trouve ça même humiliant en fait Julika nous envoie 20 euros merci Julie merci beaucoup point euh... oui mais le sida le mec dit le sida mais le sida tu l'attrapes par l'anus essentiellement si t'as ouais. si pas de rapport homosexuel et si ta femme elle, si la nana elle a pas couché avec des blacks n'auras euh, pas le sida en baisant avec elle par la chatte quoi mais tu peux avoir d'autres choses aussi hein. Et bah, après euh, vous faites ce que vous voulez hein. voilà moi c'est euh... écoute vous n'allez pas me casser les couilles hein. parce que euh, je veux dire euh, ça peut paraître contradictoire mais euh, en fait vous par exemple vous pensiez qu'il ne fallait pas se mettre de masque pour se protéger du Covid, bah, moi je pense que je, je pense que le, le, les, les, les risques sexuels euh, bah, ça me, je ne le prône pas mais je le dis simplement euh, un risque sexuel hétéro avec une femme qui vous plaît ça fait, partie, euh, ça fait partie aussi de la vie. On ne peut pas constamment se dire, ah, tiens, je vais peut-être avoir ça, je vais peut-être avoir ci. Euh, voilà, euh, c'est au feeling. Si vous vous doutez que, enfin, si par exemple, euh, vous, vous voulez vraiment vous assurer qu'il n'y a pas de problème, bon, mais dans ce cas, dans les premiers rendez-vous, vous flirtez. En plus, maintenant, il y a des moyens. En fait, maintenant, il y a un test que vous achetez en pharmacie qui vous permet de voir en quelques secondes si le partenaire euh, ou la partenaire a le sida. C'est un test qui est, qui est franchement fiable. Euh, donc euh, voilà, il euh, y a pas de raison non, les gens mettent une capote parce qu'ils veulent vraiment pas d'enfants, c'est surtout ça. Hein c'est surtout ça, parce que parce que quand une femme elle est vraiment chaude, euh, si vous voulez pas mettre la capote, euh, c'est pas elle qui va vous retenir. Hein euh, hein vous voulez pas me la faire à moi. Hein je connais comment ça marche, une bonne femme. Hein c'est euh, tu sais c'est déclaratif. Hein <laughs> Mais t'es clean, hein ouais ouais, je suis clean, t'inquiète. <laughs> Et toi t'es clean oh, Ouais ouais ouais. <laughs> la meuf qui se dit qu'elle est clean. Tu es vraiment clean non, oh, eh. non, mais voilà, évitez l'anus. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous éviterez beaucoup d'ennuis comme ça. À isoler. Évitez ouais, l'anus. Évitez l'anus, ouais. Surtout le vôtre. Hein. Mais, euh, mais aussi euh, celui du partenaire. Salut, Daniel. Ouais. Oiseau de Jupiter. Oiseau Je de considère hein. Jean-Marie Le Pen comme la. Figure fondatrice du mouvement français contre l'immigration massive, ouais. ainsi que toutes ses conséquences sociales et économiques qui nous font royalement chier aujourd'hui. GMLP est pour moi le symbole de la force d'attaque, grand orateur, de la sagesse et de la vision incarnée pour la protection de l'identité blanche européenne combattant tous ces gauchistes de merde et leurs alliés. Qu'en qu es-tu pour toi? Quand. As-tu entendu le nom de JMLP pour la première fois As-tu des anecdotes sur lui à nous raconter Merci. Ah, C'est une bonne question. Euh, quand j'ai fait mon entretien avec Jean-Marie Le Pen, bah oui, j'aurais pu dire ça. J'étais quand même très fier d'interviewer Jean-Marie Le Pen dans Vive l'Europe. C'était un beau moment. Et je pense que c'était une belle interview. Et je lui ai dit quelque chose qui est vrai, euh, qu'il qu était à la base de mon engagement politique. C'est-à-dire que c'est voir les, les, les envolées euh, lyriques, je dirais presque. Et les Il était très bon discours, Jean-Marie Le Pen, euh, qui, qui m'ont donné envie de m'engager. Je trouvais qu'il avait raison. Euh, je dirais surtout dans les débuts des années 2000, entre 2000 et 2005, je trouvais que Jean-Marie Le Pen était vraiment à son max. Et, euh, et donc moi, ouais, même si maintenant il y a, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont critiquables chez lui, en tout cas, je pourrais pas, je pourrais jamais cracher sur lui parce que il a participé à l'éveil nationaliste d'énormément de gens en France. C'est un, un mec à charisme fou. Euh, une France en voie de disparition, d'ailleurs, d'un très haut niveau culturel euh, pour un homme politique, je veux dire. Hein. Donc euh, Vraiment, non, non, que du bon, que du bon. Hein, que du bon euh, euh, je ne saurais pas dire euh, en particulier ce, qui retenu, ce, qui ce que j'ai retenu chez lui, mais euh, voilà, il y avait un discours qu'il qu avait tenu, par exemple, au Parlement européen. Euh, C'est un discours qui commence par la crise et, et l'enfant naturel du mondialisme, idéologie idolétrant, idolâtrant la mondialisation au lieu de la contrôler. Tant, euh, au, au lieu de la contrôler... Tant que c'était possible, euh, voilà. C'est un discours absolument génial. Alors très nationaliste Ce nationaliste, c'est pas un discours de nationalisme européen. mais Enfin, c'est un discours qui, quand tu as, une... bah, enfin, quand tu entres en, en, à droite hein, en politique, tu es euh, je sais pas, es époustouflé, quoi. Tu te dis, voilà, c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Donc euh, non, c est, c est, je pense que c'est un grand homme français du XXe siècle et je pense qu'il restera, oui, même s'il a fait beaucoup d'erreurs. Et euh, je pense qu'il a péché par ego, comme beaucoup de gens, malheureusement. Voilà. Bonsoir Daniel. Bonsoir. bonsoir Robin. Nous dit Jérémy V. Ouais. Je débarque à la fin de la bataille. Félicitations pour tout votre travail. Le live d'hier sur Rochdit était magistral et m'a donné des armes pour contredire une fois de plus mon sauralien de père de 70 ans, qui a tendance à suivre tout influenceur ce disant de droite. De Papacito à Filippo, en passant par Asselineau, Moreau, EER, etc. J'avais réussi à le convaincre de voter Zemmour en 2022, alors même qu'il était sur une ligne Indie-Soral. N'en suis pas peu fier d'ailleurs. Bravo. Ceci dit, j'aurais une question d'ordre historique par rapport à la période du Moyen-Âge, Oui. à laquelle se réfèrent souvent les droits d'art. Ma grand-mère, paix à son âme, me disait souvent que c'était sa période préférée et m'a légué toute sa collection de livres de Régine Pernoud. Ouais. Illustre médiéviste. Et il semble que le Moyen-Âge n'était pas cette période de famine et d'obscurité que l'on a tendance à s'imaginer. Que c'est surtout la République et Hollywood qui ont participé à cette image sombre de cette période. Toi qui as beaucoup lu, n'est-ce pas une erreur de systématiquement prendre le Moyen-Âge comme exemple à ne pas suivre Sauf pour ce qui est du progrès technologique où, certes, il était possible de canner du nautite. J'espère m'être bien fait comprendre. Hein. Et bonne continuation à tous les deux, DSL, pour le pavé d'Affinois qui se mange avec les doigts. <laughs> euh, c'est un excellent commentaire. Alors, euh, oui, j'ai une bonne culture livresque générale. Après, euh, j'ai des lacunes. Euh, je pense que je ne lis pas forcément assez de livres d'histoire parce que pourquoi je n'en lis plus euh, C'est parce que je considère qu'on surestime l'importance de l'histoire dans la politique contemporaine. Voilà, je, je pense que, que c'est une dérive de droite art qu'on croit qu'en connaissant bien l'histoire, on va avoir une influence plus importante sur le présent politique. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'au contraire, même l'histoire est un poids, parce que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Après, l'histoire, pour la culture générale, est très intéressante. Euh, voilà, puis tu as quand même des récurrences à travers l'histoire. Sur le comportement des peuples. Voilà, c'est intéressant à un autre niveau. Mais je préfère lire euh, des essais politiques contemporains, je préfère lire des ouvrages de philosophie, je préfère lire même de la littérature. En fait, je trouve que la littérature de haut niveau hein, la littérature de haut niveau dit plus d'une époque que les journalistes de l'époque. Et ça, c'est vrai à toute époque. Parce que le littéraire va entrer dans le détail. En fait, à travers la psychologie des personnages, quand vous lisez un, oeuvré, un, quand vous lisez un, un, un romancier français du 19e siècle, vous. Entre, entre guillemets, hein, vous comprenez le 19e siècle. Alors, vous comprenez par son point de vue, bien sûr, puisque c'est un, un point de vue d'ailleurs souvent bourgeois, salonnard, euh, ou au moins de gens qui ont connu ces, euh, ces, ces, ces milieux-là. Mais, mais je veux dire, ça reste quand même plus précis finalement qu'un livre d'histoire lui-même. Qu'est-ce qu'était le Moyen-Âge Qui peut le dire, franchement Qui peut le dire c'est une époque en plus où la culture de l'écrit n'était pas. Il y avait des écrits au Moyen Âge, mais je veux dire où, où il n'y avait pas. Euh, euh, c'est une culture qui était plus basée sur l'oral, où euh, il, y a des, il y a des pans entiers du Moyen Âge, où on a un manque d'information. Et moi, j'ai moi, envie de te en répondre à ta question comme ça, c'est que on, en fait, on a, tous des, une, on a tous, on porte tous un regard esthétique sur le passé, plus qu'un regard objectif, parce qu'on n'a pas connu ce passé. Et certains vont esthétiquement être plus intéressés par. Ou attiré par la période de l'Antiquité grecque, par l'Antiquité romaine, euh, d'autres plus par le Moyen-Âge, d'autres plus par la Renaissance. Moi, moi c'est plus la Renaissance. Voilà, Moi, c'est plus euh, Florence au XVIIe siècle. Voilà, voilà, voilà. Si, si je devais voir ce que ça donne, c'est ça que je voudrais. Mais ça se trouve, j'irai et puis je serais déçu, J'irai bien, enfin, c'est pas du tout ce, que je ce à quoi je m'attendais. Et j'ai eu ma période Moyen-Âge, une période où je me disais, esthétiquement, il y a un truc dans le Moyen-Âge, les donjons, les. Euh, euh, la manière dont sont habillés les gens, la musique, euh, euh, même cet obscurantisme esthétiquement à quelque chose... De... Par exemple, je trouve qu'on ne fait pas assez de films sur le Moyen Âge. Euh, qui t'a inventé en partie euh, par fantaisie ce qui pouvait s'y passer, mais c'est un, un, une période qui, qui nous semble à nous un peu magique en quelque sorte, parce que l'Europe était un peu une forteresse, il y, un, il y a un côté un peu figé, un peu dans le Moyen Âge, euh, qui est rassurant en fait. Euh, quand quand l'histoire avance peu sur des siècles, il y a un côté, il y a un côté rassurant. Euh, c'est un peu comme l'Égypte antique, euh, c'est ce, ce truc qui s'étale sur des milliers d'années, où on a l'impression qu'en fait, c'est qu'une impression, hein, c'est un sentiment qui est... Euh Comment dirais-je euh, qui, 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 qui n'est pas rationnel en fait, hein. mais on a l'impression que c'est pas passé grand chose pendant des milliers d'années, que, que, que c'est une histoire longue, voilà, de, de construction de pyramides sur des décennies, des, des centaines d'années, euh, que, que voilà, c'est pas trop en fait, c'est un mystère et, et le Moyen Âge reste un mystère et je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont attirés par ce mystère. Maintenant, euh, voilà, je ne je peux, je, voilà, je peux pas te signer que par exemple, les hommes étaient plus heureux à l'Antiquité qu'au Moyen Âge ou le contraire. En fait, on n'en sait rien. En réalité, on n'en sait rien. Ce que je sais, c'est que moi, je suis quand même, je suis, je suis assez libertaire dans l'esprit. Et moi, je pense qu'un système théocratique, ce qu'était le Moyen Âge, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment pété les burnes. Vraiment, hein, vraiment. Je pense que je me serais, j'aurais fermé ma gueule par instinct de survie. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'aurait fait chier. Euh, et, et les gens sous-estiment à quel point la théocratie c'est dur. C'est-à-dire, en fait, il y a un dogme, si tu ne le respectes pas, tu es, es, es plus qu'exclu de la société, tu es vu comme un ennemi, tu es vu comme un, comme un non-humain. Et, et, et on est tellement sorti de ça en Europe, et j'ai tellement pas envie d'y re revenir, que le Moyen-Âge ne m'attire plus du tout, en fait. Salut, Dani et Robin de Thomas D. Merci pour cette série de live. Vous régalez. Voilà une petite contribution. 50 euros, c'est pas petit. Ouais, hein. C'est pas petit. En hein. signe d'encouragement et de gratitude pour votre travail, encore un grand merci d'un ex-salle gauchiste. Ah. Entre parenthèses, plusieurs votes pour Mélenchon. Oh putain. Qui se soigne par des remèdes de cheval conversanesque. Merci, Zouk. Merci beaucoup. Excellent message. Ouais. Ça fait plaisir de savoir ouais, qu'on ouais, a ramené à nous un ouais. mec de gauche. Un bonheur, <laughs> un délice. <laughs> Alors, euh, on a un certain Lucas C que tu vas connaître, puisqu'il ouais. nous dit « Abonné SDL depuis deux ans, Yes. croissance vs décroissance est un faux débat. Okay. Depuis quand la ligne antilibérale empêche la concurrence et l'innovation Qui a incarné cette ligne dans l'histoire Le modèle de la Grèce antique et récemment les, et récemment les Allemands au XXe siècle. Sans troller, je suis très sérieux, en quoi leur idéologie était contraire à l'émergence de la technologie Reinhard Hohn, donc H -O -H -N, juriste et penseur de leur révolution culturelle, fini directeur de la plus grande école de commerce d'Allemagne après-guerre, CF libre d'obéir, de Johann Chapoutot. Pourtant, il est anti-libéral jusqu'au bout des ongles, car c'est la philosophie du contrat et de la bourgeoisie. Ça ne l'a pas empêché de créer le management de Bad Habsburg, Hats encore utilisé aujourd'hui, basé sur le darwinisme social. L'antilibéralisme n'est pas un tiers-monde, c'est faux, un tiers-mondisme. C'est pour Soral et De Benoît qui sont des saloperies de gauchistes marxistes. La ligne antilibérale de droite s'est allée vers le mieux, qui veut souvent dire le plus, logique de la croissance libérale, croissance slash libérale, mais pas toujours. Si on veut avoir grâce aux IA un plus haut QI, une meilleure santé, etc., c'est pourquoi Quel est le sens C'est le beau. Quel rapport avec l'économie Autrement dit, une vie bonne et belle, sinon ça n'a pas de valeur en soi. On veut le bon et le beau, instinct aristocrate anti-bourgeois. Pour cela, la technologie est de grande utilité. Elle doit être à leur service et non pas l'inverse. L'écologisme, faute de mieux, est un beau projet. Je suis anti-immigration, quand bien même ça fonctionnerait parce que ça produit de la laideur, du mauvais et du médiocre. Sortez de cette logique libérale et retrouvez vos instincts d'artiste. Pardon, mais un libéral qui dit expliquer le surhomme de Nietzsche, c'est à s'arracher les cheveux. Merci pour votre travail et ce conflit avec Rojdi, qui extrêmement fécond pour moi. D'ailleurs, je suis persuadé qu'Egonon serait sur la même ligne. Oui, alors c'est il y, y a pas mal de choses intéressantes, d'autres avec lesquelles je suis pas d'accord. Déjà, en fait, je pense que tu tu commets une erreur qui est classique à droite, c'est tu as une vision esthétique du monde et, euh, et c'est une erreur. En fait, euh, la politique n'a aucun rapport avec l'esthétique. Euh, la politique c'est l'efficacité. Euh, il arrive que dans des périodes euh, politiques, comme j'ai expliqué hier, l'esthétique et la politique se rejoignent, notamment dans les périodes qui étaient, euh, je dirais, pré donc euh, irrationnelles. C'est-à-dire qu'on allait créer du beau parce qu'on avait l'impression qu'on aurait un, un euh, une, euh, une gratification, une récompense euh, dans l'au-delà. C'est l'époque des indulgences, hein. c'est l'époque où on donne de l'argent à l'Église parce qu'on a l'impression qu'on se, qu se garantit une place ensuite au paradis. Je suis désolé, mais ces choses-là ont existé, c'est pas une façon de te lâcher le monde d'avant, c'est tout simplement la réalité. Maintenant, euh, tu, tu parles, donc, pour être clair, parce que tu ne mentionnes pas, tu parles du national-socialisme hitlérien et tu parles de la Grèce antique. Alors, déjà, franchement, euh, dire euh, d'un régime qui a 2000 ans s'il était libéral ou socialiste, euh, pour moi, c'est vraiment une. C'est capillotracté à un niveau, genre, je veux dire, le, le niveau de complexité économique on a aujourd'hui, est si différent de, de, de l'époque euh, romaine ou l'époque grecque, euh, porter un point de vue libéral ou antilibéral sur ce qu'était la Grèce ou ce qu'elle n'était pas, pour moi, c'est vraiment, pour, pour moi, vraiment la branlette intellectuelle. Je ne dis pas que tu fais de la branlette intellectuelle, mais je dis que je ne veux pas aller sur ce terrain-là parce que je pense qu'on dirait beaucoup de conneries. On dirait beaucoup de conneries. Euh, qui, qui peut prétendre connaître à fond l'économie grecque, euh, ses ressorts internes, sa je veux dire, ses nuances euh, pff, Bon, euh, par contre, le National Socialiste, c'est plus récent, effectivement. Mais alors, je dirais qu'il y avait une hypocrisie dans le National Socialiste, c'est qu'il y avait une critique du capitalisme, mais au fond, au fond, quel était le projet d'Hitler hein? le, le, Je parle du point de vue économique, je ne parle pas du, point, pas du point de vue racial. C'est simplement concurrencer. En fait, en fait, Hitler s'est rendu compte que les États-Unis étaient en train de gagner la bataille des nations et ça le faisait chier. Voilà, ça le faisait chier. Et donc, euh, il a essayé, avec une méthode à l'Allemande, de reprendre. Euh, donc lui, il est allé au bout de son processus de pouvoir, hein, euh, de, de reprendre le leadership, d'abord en prenant le contrôle de l'Europe et ensuite en faisant en sorte que l'Europe rattrape puis dépasse les États-Unis. Bon, à l'époque, il n'y avait pas autant d'écart qu'il y en a aujourd'hui, mais 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 vrai, le projet d'Hitler, mais en fait, euh, c'est pas un projet à titre individuel, c'est pas un projet décroissantiste. Ce que je reproche à, à Rogédi actuellement, c'est moins d'être anti que d'être décroissantiste, c'était que d'être décroissantiste. S'il avait un projet euh, anti-libéral et assumé. Parce que, regarde, en fait, au fond, le projet actuel de, de Rojdi, je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il est plus proche de ce que j'étais moi il y a dix ans que de ce que je suis moi, moi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se rend même pas compte du fait que ce qu'il prône, c'est du national-communisme ou du national-socialisme, ce qui est très proche en réalité. Mais s'il l'assumait, qu'il disait, en fait, euh, mais évidemment, c'est difficile à assumer dans le monde d'aujourd'hui, mais en fait, je suis un, un, un national. Euh, socialiste, à tendance écologiste. Mais d'accord, mais d'accord. Donc en fait, tu as un projet de domination pour l'Europe par l'imposition euh, via un tyran, via un dictateur, d'un régime de travail, de restriction euh, et de production dans une logique hégémonique pour l'Europe. Donc tu as un projet pour l'Europe qui est quand même un projet, euh, en fait, au sens philosophique, de croissance. C'est-à-dire, euh, euh, en gros à euh, sig, voilà quoi. Euh, alors que non, c est, c est, c est le, le projet de droite non seulement il est anti mais en plus il est, euh, il est décroissantiste, c'est-à-dire qu'il est faiblard. Euh, est, vivons heureux, vivons cachés. Et, et, et ça, je dirais euh, par delà euh, la critique que tu apportes, qui peut, avoir, euh, qui peut être intéressante, euh, c'est un projet que je, trouve, euh, que je trouve opposé au projet de droite. Voilà. Et maintenant, maintenant je te dis simplement que. Pourquoi, malgré tout, je préfère le national-libéralisme au national-socialisme C'est que, tout moi, je suis un pragmatique. Et les deux régimes antilibéraux du XXe siècle ont perdu. C'est tout. C'est tout, Lucas. Ils ont perdu. Le national-socialisme est mort en 1945 dans un bunker euh, et, et, avec la tête explosée d'Hitler. Le national-communisme européen est mort euh, avec la chute du mur de Berlin. Euh, et, et l'effondrement de l'URSS c'est tout Alors, vous, vous pouvez croire qu'il va renaître d'une manière ou d'une autre, vous pouvez croire qu'il va renaître mais moi j'y crois pas, moi je crois qu'à un moment donné il faut se dire le libéralisme a gagné parce qu'il était plus efficace il faut imaginer un libéralisme qui soit en accord avec nos idées fondamentales et euh, qui nous permette de vivre euh, dans un monde qui ne soit pas africanisé voilà, quant à la beauté et ça je reviens en fait au début de ta question Bon sang de bonsoir, pourquoi c'est la société qui devrait s'occuper de ça Pourquoi c'est la société qui devrait s'occuper à votre place de cette histoire du bien, du beau, du vrai, de la vérité, etc. Ce sont des notions philosophiques et personnelles. Vous voulez euh, une vie connectée au beau, mais vous pouvez l'avoir dans le monde libéral. Vous pouvez l'avoir. En fait, la, la seule chose, c'est que dans une logique d'efficacité, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre, l'urbanisme est moche aujourd'hui alors qu'il était, il était beau il y a, il y a 100 ans et plus encore avant, oui c'est sûr c'est plus joli l'osmanien que ce qui se fait aujourd'hui, voilà, mais il y a plein de beauté dans le monde d'aujourd'hui mais, 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 mais les réacs et les néo-national-socialistes les les néo ne la voient pas tout simplement euh, par, euh, par anti-modernisme et, et, et je dis hein, encore une fois je sais d'autant plus que c'est ça la dérive parce que c'est une ligne que j'avais autrefois mais c'est pas à l'état de s'occuper de, de notions esthétiques bonsoir voilà, c'est pas à l'état de créer les conditions de bonheur qui font qu'à un moment donné, euh, le chevalier blanc, trop pur pour ce monde dégoûtant, va faire des enfants, vous pas en faire, quoi. C'est ça que je reproche à Rojdi, c'est que. C'est ce que je lui ai dit dans l'émission, mais je l'ai pas dit pour le clasher, je le dis parce que je le pense. C'est que c'est pas à l'état de corriger le mal-être de, 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 du petit Julien Rojdi, quoi. Voilà, c est, c est, à un moment donné, il faut se battre, quoi. Il faut se battre. Euh, le monde, parfois, a ses laideurs, a ses beautés. Euh, et, et moi, je trouve que la critique de, de la société libérale à bon dos, putain, quoi. Euh, parce qu'on est des produits de cette société, euh, parce qu'elle euh, qu produit aussi de la beauté, bon sang de bonsoir. Euh, comme, comme, si un, comme si un film au cinéma, c'était pas une expérience magnifique. Ça, on n'en parle jamais, quoi. C'est une expérience qui n'existait pas euh, il y a 80 ans. Et, et plus ça va, plus le plus visuellement, le, 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 le cinéma est époustouflant. Euh, donc, donc, je comprends pas, quoi. Je, je comprends pas, vraiment. Je, je comprends pas pourquoi on insiste... Pour dire qu'en gros, il y a un problème, que le système est vicié. Mais, mais, mais putain, c'est pas... Le, le, les systèmes sont toujours imparfaits. On peut essayer de les corriger, mais... Imaginer une révolution totale aujourd'hui est, est vraiment très... Euh, euh, très ambitieux. Voilà, très ambitieux. Je pense qu'on peut faire des petits ajustements. Et on peut faire en sorte, de, en tant qu'Européens, d'être plus en sécurité... Dans un monde euh, agréable et productif. Et après, ben, les forts réussissent, les faibles tombent dans le vice et le supr, et c'est leur problème. Ah oui, je ne <laughs> sais pas comment. Faut <rire> je... <rire> Careful Icarus. Yeah, man. Pause avec, dans 15 minutes. Hein. Avec 50 euros. Boom. Je Ditch. tiens à te remercier pour ce mois de live, nous dit-il. L'année 2023 a été tumultueuse et j'ai eu peu de temps pour te suivre. Merci beaucoup. C'est avec une joie sincère et non feinte que je te retrouve, que je retrouve tes contenus, qui sont d'une excellente qualité. Je ne sais pas si le public réalise à quel point tu fournis le meilleur travail dans la droite francophone. La vie est trop courte et tu es le seul influenceur politique à en magnifier la valeur de manière aussi sincère et décomplexée. Moi qui ai le caractère opposé au tien, plutôt pessimiste, je me retrouve en toi sur l'efficacité et le pragmatisme. Je ne retrouve pas chez les autres influenceurs de droite l'écho à mes préoccupations parce qu'ils aiment trop errer dans les abstractions. Cela fait presque 13 ans que je te suis. Waouh C'est depuis le début en fait. Mais ça fait, ça fait longtemps que je le vois son pseudo, Carfoulicaris. Hein. Je, je l'ai rencontré me... en plus, ce mec. Ouais, il doit connaître euh, les débuts euh, sur Dailymotion et tout. <laughs> il m'arrive d'être en désaccord avec toi. Mais j'ai plus de plaisir à être en désaccord avec toi qu'à être en accord avec des gens dotés d'une pauvre d'une âme pauvre. J'ai trouvé en toi un frère de pensée, une âme généreuse et un ami extrêmement sympathique. J'ai comme tu le sais, perdu pas mal de famille récemment et je pense à toi comme un membre de ma famille. Eh ben, quelqu'un que j'ai envie de voir réussir dans ses projets car je sais à quel point tu y tiens sincèrement et tu as la motivation pour le faire. Les tartuffes sont nombreux et je suis un bon juge de caractère. « Toi, mon ami, tu es un gars entier. Je te respecte pour ça et je t'aime beaucoup. Euh, » Voilà. Donc après, c'est une demande en mariage. Ensuite, ah. il dit « mais salutations à Robin, qui est une véritable valeur ajoutée à tes émissions. On devine que c'est un mec bien. C'est pas faux, c'est pas faux. Merci à Carful Icarus. Bah, » Merci beaucoup pour ce message très, Florilège. très touchant. Euh, moi aussi, j'ai beaucoup d'affection pour toi et je vais te dire quelque chose qui te fait plaisir qui te fera plaisir et euh, que je pense... 13 ans. Ouais, on a vraiment un vieux de la vieille. Je trouve que t'écris très bien. T as une écriture vachement fluide et euh, t'écrire, enfin, euh, c'est joli ce que t'écris, mais c'est rarement, enfin euh, c'est même, même jamais euh, artificiel. Chaque mot a, est pesé, chaque mot a son sens, et donc je t'invite à, j'invite à écrire un livre. Ah ouais. ouais, je okay. t'invite à écrire un livre. Je, le, je serai, plus, je serai, un, je, je serai ah. un lecteur. Euh, si je l'ai dit, ça en verra. Parce qu'après, il y a des notions économiques aussi. Hein. Ah, C'est-à-dire ah. que si son livre ah. est super, mais qu'il euh, ne se vendra pas, <laughs> je vais dire c'est parfait. Ah, il hein? a envoyé 50 euros. Là, euh, ouais, c'est oh, bah, oui, ouais, un peu plus cher que ça. Quoi. <laughs> mais, euh, mais oui, non mais je le lirai avec plaisir. Si tu écris un livre, enfin, euh, si tu me donnes un ouvrage que tu as écrit, je le lirai avec plaisir parce que tu as une écriture qui est fluide et c'est devenu de plus en plus rare, les euh, écritures comme ça. Donc, oui, et puis je, je sais euh, ce que tu traverses en ce moment, je sais que c'est dur, donc euh, merci à toi. Merci Moi, à toi. je sais pas, mais courage. Ouais, bah, des gens dans sa famille, des pertes dans sa ouais. famille, voilà. Ok. Alors, euh, le bouquetin nous dit Daniel, comment vas-tu recruter les arbres qui joueront les méchants dans ton court métrage Crois-tu que Jean Messia sera partant ah Ouais, mais c'est pour ça que c'est très difficile de, de faire un film directement politique, c'est que déjà pour trouver les recrues. Euh, tu vois euh, j'avais le même problème hein, quand j'étais euh, ça, fait, ça fait 15 ans que j'ai le même problème hein. c'est euh, tu veux faire un court métrage ou en fait, finalement, tu, par exemple, tu parles des banlieues, mais, mais juste inverse le, le rôle du, du, du gentil et du méchant, en fait. Le, le gentil, c'est le blanc, et le méchant, c'est des racailles de merde qui essaient de le défoncer, tu vois. En fait, je veux juste voir un film comme ça, quoi, dans ma vie. <laughs> et vu qu'il n'existe pas, t'as envie de le produire. Mais va trouver euh, l'arabe qui voudra jouer le rôle euh, de l'arabe méchant. C'est pas évident, c'est pas évident. Euh, je voudrais revenir sur, sur la question d'avant, sur le national socialiste parce que je m'aperçois qu'il y a un argument que j'oublie. La question d'avant la question d'avant non pas euh, Icarus mais avant Icarus euh, Lucas C qui disait mais euh, finalement la, la vraie question de Lucas C c'est pourquoi euh, c'est pourquoi foutre le national-socialisme au feu ça c'est vraie question euh, et en fait parce que vous comprenez pas que la défaite a un sens voilà la défaite a un sens si Hitler a perdu c'est parce qu'il devait perdre. Voilà, c'est ça l'histoire. On oh. ne on revient pas en arrière. Si Hitler a perdu, c'est qu'il a commis des erreurs. Et ce que j'ai fini par comprendre, je crois, avec un certain degré de certitude, c'est que les erreurs d'Hitler sont consubstantielles à la ligne totalitaire et antilibérale. C'est-à-dire que c'est une ligne qui est trop fanatique. Voilà. Et la ligne, la ligne nationale, bien sûr, en fait, c'est simple. Un pays, en fait, tu peux. S'il n'y a pas national, tu t'as rien dans un pays. Tu vois, c'est ça que le plus important, c'est pas qu'un pays soit socialiste ou libéral, c'est qu'il soit national. C'est-à-dire que les décisions qui soient prises par l'État euh, euh, bénéficient d'abord aux nationaux. Et, et du moment que tu as ça, moi à la limite tu pourrais considérer vivre dans un pays qui est national-socialiste mais pacifique, comme l'étaient les pays scandinaves, on va dire, dans la deuxième partie du XXe siècle, là, euh, qui ont toujours ça. En fait, hein, c'était du socialisme, euh, du, du socialisme. Euh, euh, national, je ne peux pas, pas le dire mieux que ça, mais, mais, pas, un, mais pas haineux et pas conquérant. Euh, mais, in fine, ça, ça veut quand même dire quelque chose que ce soit toujours les pays libéraux qui sont devant et qui, et qui gardent ce leadership et qui l'emportent toujours. Parce qu'il y a une supériorité philosophique que j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai fini par comprendre dans le libéralisme. Parce que les gens les plus intelligents qui font le monde préfèrent la liberté. Voilà. Et quand tu es dans un système national, socialiste, national, communiste avec une autorité forte, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu as ton entreprise, tu as toujours l'État qui va essayer de la nationaliser. Et si tu ne veux pas la nationaliser, il va, il va essayer de te la nationaliser par des moyens plus coercitifs. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, tu vas dire Ah ouais, tu veux, tu veux me prendre mon bébé? Pour que je touche moins d'argent et pour qu'on fasse un truc qui va dans le sens de ton idéologie, alors que je la partage à 70%, mais pas à 100%, ben, je m'en fous, je me casse aux États-Unis. Et voilà comment les États-Unis ont dominé le monde. Parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Pourquoi euh, Pavel Durov a été obligé de quitter euh, la Russie? Parce qu'on l'a forcé à nationaliser VK. Là-dessus, il fait quoi? Il se casse de Russie, il crée Telegram et il défonce tout avec Telegram supériorité du libéralisme voilà quoi c'est à dire que euh, c est, c est... les gens qui font le monde les gens qui ont un haut QI les gens qui ont, qui ont un esprit d'entreprise les gens qui les gens qui font le monde je peux pas le dire mieux que ça et eh ben ils... ils font avancer ce monde plus rapidement ils font plus de choses ils sont plus productifs euh, ils ont de meilleurs résultats quand ils euh, évoluent au sein d'un système libéral c'est pourquoi ils le sollicitent voilà. Et il est faux de dire qu'un système peut être libéral sans avoir, de, de, je dirais, de, 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 de verrous nationaux. Le, actuellement, le Japon est un pays national libéral, voilà, et il fonctionne très bien, voilà, il fonctionne très bien. Alors après, vous allez me dire, ben, ça m'énerve, tu vois, c'est les mecs qui disent « Ouais, mais alors, euh, euh, tu prends pas en compte ?» Putain, mais, mais je déteste cet argument. Les mecs qui disent « Ouais, mais les Japonais, maintenant, ils sont dégénérés, ils font même plus l'amour, etc. Mais » C'est un moment de l'histoire du Japon. Ce n'était pas comme ça à 50 ans, ce ne sera peut-être pas comme ça dans 50 ans. Et, et, et les, Japonais, euh, les Japonais, je dirais, que, qui, qui, euh, qui n'entrent pas dans cette décadence actuelle du Japon, bah, eux, ils continuent d'avoir des enfants, ils continuent d'avoir des relation sexuelle. Si leur femme ne veut plus baiser, ils vont au putes. Euh, je veux dire, c'est juste un élément du Japon. C'est juste un élément du Japon. Pourquoi focaliser toujours sur la décadence de certains pays Si vous cherchez la décadence d'un pays, vous allez toujours en trouver. Vous allez trouver de la décadence en Afghanistan. Oui, c'est un pays super religieux. Oui, c'est un pays où il y a une forte autorité du père. Oui, c'est un pays où il y a encore la peine de mort. Donc en fait, conservateur selon les, 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 les valeurs de, de droite actuelles. Oui, mais c'est un pays où les, où les hommes sont tellement frustrés sexuels parce qu'on voit les femmes du matin au soir qui baissent des enfants. Et voilà, mais voilà, mais en fait, on, on ne juge pas un pays. On ne juge pas les États-Unis. Comme étant un pays euh, décadent parce qu'il y a des tueurs en série aux États-Unis. On ne juge pas le, le, le Japon comme un pays décadent parce que les Japonais en fait euh, sont des euh, je dis regarde des, des vidéos de, de, de bukek et de bukake et vont dans des barachas. Tu vois, on, on, c'est juste nul quoi. Ce prisme de la décadence, il est juste nul dans tous les systèmes qui soient nationaux, socialistes, socialistes, social libéral ou national libéral. Il y a des gens qui sont dans l'excès, qui sont dans, dans l'ubris. Euh, et, et, et en fait, ce sont des décisions individuelles. Ce, ce pas, il il n'existe aucun régime qui va créer des êtres qui ne seront pas décadents. Ça n'existe pas. La droite fait fausse route. La droite est trop focalisée. Et ce que je dis vraiment est important à isoler c'est que la droite se, se trompe de matière, de discipline. La droite ne fait pas de la politique elle fait de, 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 de la philosophie historique, constamment. Elle là genre comme disait Barrès, comme disait machin, comme disait truc, les époques changent constamment, Le 2023 n'a rien à voir avec 1970, 1970 n'a rien à voir avec 1920, 1920 n'a rien à voir avec 1810 et putain la droite est toujours à essayer de faire valser euh, Nietzsche avec euh, Nietzsche avec euh, Maurice Barrès pour t'expliquer pourquoi euh, les Français N'arrive pas à voter Front National en 2023, bordel de merde! C'est. Non, mais faites des, faites des sciences sérieuses, quoi. Faites, faites de l'économie actuelle, faites. Euh, de, de, voilà, renseignez-vous sur la science actuelle, sur les technologies actuelles, euh, sur. Euh, euh, essayez de comprendre les gens plutôt que de les juger euh, immédiatement. Quand vous, euh, quand vous jugez un pays que vous ne connaissez pas, prenez tous les éléments en compte, pas les éléments qui vous choquent le plus, et vous verrez qu'en fait, euh, on faut, au final, ce qui compte, c'est qui domine voilà qui domine, quelles sont les puissances émergentes. voilà, et, voilà et, et, et quel modèle applique-t-elle voilà, euh, la chine est très puissante, mais comment, elle, comment quelle est la, la, la condition de sa puissance une dictature très forte, très incitative, très incitative au travail, qui pendant des années a forcé les gens à faire qu'un enfant et pas, et pas deux ou pas trois. est-ce que on veut vraiment ça pour l'europe c'est un modèle qui fonctionne c'est un modèle qui fonctionne donc, euh, est-ce qu'on veut ça pour l'Europe Si on veut pas sur le, ça pour l'Europe, on veut quoi d'autre Alors, voilà, moi, je trouve que, je trouve que le Japon, c'est un équilibre qu'il qui faudrait européaniser quand même. Les, les Européens travailleront jamais autant que les Japonais, mais enfin, on, on peut tendre vers ça. Alors que je pense qu'on ne peut pas faire tendre l'âme européenne vers ce qu'est la Chine aujourd'hui, qui est beaucoup trop rigide. Mais, mais voilà, et, et c'est pour ça, que vraiment, sortez-vous de la tête que le national-socialisme, avec les oripos ou pas des années 30, va revenir. D'accord les Européens d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 100 ans. Ils ne voudront pas de ce forfait. Ils ne voudront pas de, ce, ils ne voudront pas de cette histoire d'alliance du bien, du beau, du vrai. Vous ne faites pas rêver les gens d'aujourd'hui en leur montrant une statue d'Arnaud Brecker. Il voilà, n'y a, 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 a que les FAF qui, 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 qui bandent là-dessus. Il faut, faut arrêter avec ça. Euh, les, les gens aujourd'hui, ils veulent vivre plus longtemps dans de bonnes conditions, dans de la paix, dans un pays qui va de l'avant, euh, qui, qui va vers le futur. Hein. Voilà, et, et, et parmi cette population, la, popu euh, la population, on va dire, qui est la plus délicate, la plus raffinée, eh ben elle, elle, elle écoutera toujours plutôt du Chopin que du, euh, que du Booba. Elle, elle aura toujours des beaux tableaux et pas des, pas des croûtes contemporaines. Elle, elle aimera toujours manger dans des bons restaurants. Elle saura toujours reconnaître le beau là où il est. Voilà, c'est pas à l'état de vous garantir la beauté. Euh, le bouquetin. Euh, non, je viens de le lire. Le bouquetin. <laughs> Animal étrange d'ailleurs. Oui, oui. Il me demandait comment tu recruterais les arbres qui joueraient les méchants. Ouais. Euh... T'as le coca tôt, avec toi là ou pas euh... Ah, mais de euh... toute façon, on va faire la pause là. Je tenais à te féliciter pour ce succès. Il oui. nous dit euh, XPCM, <laughs> on ne sait pas, un anonyme quoi. Je tenais à te féliciter pour ce succès. J'en profite pour te demander une explication sur la scène du bain au coca. Que j'ai aperçu dans un célèbre documentaire sur ta personne et qui m'intrigue fortement. Lol. Euh, c'est beaucoup moins mystérieux que ce que vous pensez. D'ailleurs, on va, on, après, on fera, on fera l'entracte euh, Ça nous fera du bien. Je commence. Putain, je, ce canapé est en train de me. <laughs> Il y a une arête qui est en train de naître dans le canapé. Juste, Lucas, c'est passé deux fois son don. Ah et ouais. son Si Tu veux qu'on te rembourse Il y a pas de souci. Tu nous contactes. Euh, j'ai les ressorts du canapé au milieu du trou de balle. Je tiens à le préciser, mais pile au milieu, ça fait un, un mal de chien à la roumaine à la roumaine ouais bah non c'est très simple en fait mon père a fait ah oui attends euh coup je te, je te dis ça de tête mais ça se trouve ça se trouve c'est pas exactement ça mais je crois qu'en fait mon père avait gagné à Carrefour à Leclerc tu sais un, un stupide concours où en gros il avait gagné 50 ou 100 bouteilles de coca et, euh, et ça l'a fait marrer, il se dit « qu'est-ce que je peux foutre avec 100 bouteilles de coca ?» Bon, mon père était un buveur de coca, mais de là en boire 100 bouteilles. Et en fait, euh, il a foutu ça dans la baignoire, il m'a balancé dans la baignoire. Surtout, ça s'arrête là, quoi. Mais sauf que oui, tel que c'est mis dans la vidéo, on dirait un espèce de rituel euh, satanique où mon père me, me balance du coca sur la gueule. Il y a un cooler, à côté absurde, quoi. <laisse> mais je ne sais pas pourquoi le documentariste a voulu intégrer ça là-dedans. Euh, voilà, il essaie d'opérer un lien logique qui, qui n'existe pas. Genre, euh, euh, on mis son père, mis Daniel Conversano, à 5 ans, dans un bain de Coca, et depuis, il ne fait plus jamais le même. <laughs> enfin moi, c'était juste en mode, ah du Coca, je peux le boire, et puis c'est dedans même temps, c'est trop drôle. <laughs> J'avais 5 ans, tu vois. Donc euh, voilà, c'était un moment marrant. Tu veux faire je vais faire les, faire des... vais faire ouais. les petits dons sur Petit le don. YouTube chat. Félix Printemps. Bonjour Daniel, je souhaite savoir ce que tu penses de Julius Evola. Peut-on le considérer comme un pilier de la pensée de droite contemporaine ou comme un branleur intellectuel pessimiste Oh non, branleur intellectuel, non, c'est un vrai intellectuel, Julius Evola. Euh... Et puis je dirais que, alors c'est un mystique, donc moi je, je me sens un peu éloigné de, de ça aujourd'hui. Mais la différence avec Guénon, c'est que Evola n'a jamais, euh, à ma connaissance, n'a hein, euh, jamais trahi le. le l'idéal européen malgré tout c'est-à-dire que il a quand même maintenu un, un lien avec le l'identité avec le le, le le racialisme la conscience la conscience c'est ce qu'elle cherchait la conscience raciale européenne donc euh, donc donc c'est une lecture qui culturellement est intéressante voilà après ça, ça fait partie des auteurs je dirais pas que c'est un auteur qui est surestimé je dirais que c'est un auteur qui est dépassé voilà je c'est ce que je crois je, je dirais que c'est dans le monde aujourd'hui je suis pas bien certain que et, et, et voilà et une une puissance et un intérêt, on va dire, pragmatique dans le monde d'aujourd'hui, qui, 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 est, qui est matérialiste, et qui ne reviendra pas... À ce... En fait, il faut voir que c'est une époque qui a produit de très bons intellectuels de droite, où il y avait une transition entre le monde, la modernité s'imposait, et en fait, les auteurs de l'époque avaient, avaient un enseignement qui est un enseignement euh, classique, au sens fort du mot, avec un grand C, euh, donc un enseignement qui était, qui était rempli un peu de... De, de cette âme du monde prémoderne Et en fait, euh, eux-mêmes euh, vivaient mal l'arrivée d'une nouvelle période. Et donc, en fait, il y, y a un côté crépusculaire un peu dans toutes ces œuvres qui, euh, stylistiquement et littéralement, au niveau littéraire, est intéressant, mais qui ne correspond pas, je crois, à, à l'être à, à contemporain. Euh, en tout cas, moi, je me sens assez éloigné de cette, de cette vision. Voilà. Euh, bonsoir, que penses-tu d'un putsch en France nous demande Alain D. Wow. Inenvisageable, impossible. Je pense que les gens qui croient au putsch sont des rêveurs. Euh, D'ailleurs, c'est un extrait, en fait, je l'avais isolé de, de Rochedy, tu sais, puis je ne suis pas oublié de te l'envoyer, je parce que j'ai branlé. Et, euh, et à un moment donné, <laughs> c'est fabuleux, quoi. Euh, tout ça pour ça, il arrive à la fin de l'émission pour dire, euh, non, mais de toute façon, ça va tellement être la merde que, ah, oh, puis c'est nouveau, tu vois, Robin. En fait, un chef va naître naturellement. Et il sera le leader suprême, on va tous le suivre, euh, et ce sera la révolution. Quoi. Mais attends, mais t'as quel âge, Julien Rojny, quoi Comme, comme si euh, on n'y avait pas cru mille fois. Enfin, euh, Picmal, ça s'est passé... Su... Enfin, je veux dire, comment on peut y croire dans, dans un monde où, où Général Piquemal trois jours après avoir défilé à Calais pour dire en gros, hey, « Eh, grand emplacement quand même, y il en a marre, hein, je suis général 5 étoiles, oh, on se calme. » Et trois jours après, euh, il sort de garde à vue, on lui dit « Alors, le grand emplacement ?» Et Picmal dit « Non, non, mais, non, mais j'ai exagéré, quoi. » C'est là, bon... Bon, alors ok, tu vas me dire euh, c'est un être, il y en aura peut-être un autre, mais mais c'est quand tu vas arrêter d'attendre un Napoléon Bonaparte 2020 quoi, euh, Julien, s'il te plaît quoi. Tu comprends pas que le, en fait on, on est dans la modernité, ça n'arrivera pas, même s'il existait, même si cet homme d'exception existait, il n'aurait pas les troupes. C'est plus comme ça qu'on change le monde. Voilà, le, le monde se réforme, il ne se révolutionne plus. Ce c'est pas dans nos mains, voilà. Chrono. Avec 100 euros. Et eh ben. Encore. Il lâche la purée. Question vicieuse. La ah. Roumanie et l'Ukraine semblent être les derniers lieux atteignables en voiture. Si tu n'avais pas eu peur de l'avion et que tu avais eu accès à la femme jaune, aurais-tu été nation eurasienne On adapte souvent son idéologie en fonction de soi-même. Là, ah, c'est une bonne question. Non, j'ai. C'est fini oui, oui, c'est euh, parce euh, qu'il fait des le manifeste. Euh... Ah, oui, oui c'est ça. Non, non, mais c'est intéressant. Et en fait, il nourrit son manifeste en me posant la question. Ah, c'est ça. Euh, J'ai jamais été attiré sexuellement par les Asiatiques. Euh, en fait, je trouve que les femmes Asiatiques se ressemblent toutes, qu'elles n'ont pas de forme. Euh, par contre, oui, elles sont intelligentes, euh, mais elles sont trop discrètes. Enfin, moi, j'aime les femmes joviales, euh, qui ont le cul joyeux, qui. Euh... J'aime les européennes, quoi, tout simplement. Après, pour aller au bout de ta question, oui, si, si j'avais pas peur de l'avion, ouais, j'irais bien en Amérique du Sud. Ouais. <laughs> La vérité, j'irais bien. Non, en fait, j'irais. J'irais pour toi, j'irais pour mais toi. Mais je sais pas pourquoi, depuis que je suis. J'ai appris que je suis né, c'est ridicule, mais. Depuis que j'ai 8, 9 ans, je rêve d'aller en Argentine. Et je sais pas pourquoi. Euh, pour moi, c'est comme une autre Italie. <laughs> je, je sais pas, je sais pas. En fait, il y a pour un truc. Steaks. Ouais, il y a ça. Bon, pff, ouais, les steaks, j'ai dit oui, comme ça, mais ah je ben, sais pas. Il y a des trucs qu'on sait pas. Qu pas. Ouais. J'ai peut-être un petit élément c'est qu'il faut bien comprendre qu'au début des années 90, L'Argentine était à la mode en Italie et comme moi, la moitié de ma famille était italienne. Ah, Pourquoi Parce que dans les années 80 et au début des années 90, Diego Maradona jouait en Italie. Et football, et voilà. Diego Maradona jouait en Italie et c'était un dieu pour les Italiens. Et donc, en fait, Maradona, je sais pas, était parfois présenté comme un espèce d'Italien plus plus. Alors que finalement, avec leur culture, je trouve plutôt un Italien moins moins, mais juste un, un énorme joueur de football, mais mais, mais une racaille en fait, hein, des, des, des salles de foot et un con d'ailleurs. Mais, mais un dieu du football football et, et, et on parlait souvent de l'Argentine à la télé à la raille en Italie et pour moi c'était le bout du monde en fait l'Argentine donc j'ai un peu ce rêve d'aller en Argentine puis je trouve en fait franchement je, je trouve que les, les femmes en fait voilà je trouve qu'une femme comme Shakira est super excitante super sexuelle elle, et elle quoi, est argentine non elle est pas argentine mais elle est d'Amérique du Sud quoi euh, je, après honnêtement je sais pas moi je trouve que Shakira a l'air plutôt blanche ça se trouve vous allez me dire qu'elle a 10% d'amérindiens c'est possible mais je trouve que c'est un truc qui manque un peu aux européennes c'est ce côté Chaudas, voilà. Et moi, moi, je, moi je, je dis, moi, j'aime les chaudasses, quoi. Et je trouve qu'en Europe, il y a, il a, a, bon a pas, il si, y, y a pas assez, il y a de moins en moins de chaudasses, quoi. Euh, et oui, il faut le dire, il faut le crier les Les hommes aiment les chaudasses. Les colombiennes. Voilà, voilà. Ouais, les colombiennes. Shakila, voilà, Isabelle, voilà. mes barack, euh, Je dirais que une, un peuple européen qui produit encore des chaudasses, c'est les Espagnols, quoi. Des souvenirs comme ça de, de soirées euh, à la fac, euh, pas, pas beaucoup, hein, mais mais quelques souvenirs suffisants pour dire que alors, insupportable au niveau politique, complètement conne, souvent gauchiste. Mais putain, les Espagnols, tu vois, elles font pas chier, quoi. Elles ont envie de te sucer, elles te sucent. Elles te le disent. Euh, elles veulent jouir, jouir fort, elles jouissent fort. Euh, Éloigner les enfants. Pour te montrer qu'elles sont excitées, elles remuent leur cul euh, sur ta bite, quoi. Et <laughs> ouais, des fois, j'ai envie de dire... Euh, ouais, ben bah ouais, c'est... pas c'est juste agréable. agréable, quoi. Non, mais c'est juste agréable, ouais. Planquer les gosses, mais minuit et minuit est passé. Ouais, ouais, on a envie, voilà, plus de... Plus de fion, euh, plus, plus de fion, et plus encore de plus gé... de fion. Sucez-nous, plaidoyer voilà, pour voilà. une génoïde. Je avec impatience celui-là. Ah, les gens l'achèteraient, l'agence. Lance les précommandes ce soir. Bah, le problème, c'est que ce sera acheté par des hommes, alors que c'est des femmes qui doivent acheter ce bouquin quoi, et appliquer ce que je dis. Les hommes devraient les, les offrir. C'est ouais, <laughs> pas leur merde. Ça me rend fou. Des fois, j'ai des femmes, parce que comme, on va dire, les gens m'écoutent des heures, des heures tout au long de l'année. Il euh, y a une relation qui se crée parfois avec les gens qui est de l'ordre du confident. C est, c est un, alors j'ai pas toujours le temps de répondre aux mails, mais c'est une position que j'aime bien. Et il y a des femmes en fait qui me contactent, et euh, qui me disent ouais avec mon copain ceci cela. Quels sont tes conseils Côté un peu conseiller conjugal et, et je suis toujours surpris à, à quel point les femmes ne, ne, en fait se, se prennent trop la tête sur ce qu'il faut faire parce que les femmes sont toujours angoissées quand elles aiment un homme, elles sont angoissées à l'idée que, que le mec les quitte. C'est juste qu'en en fait, un, un homme est d'une simplicité extraordinaire. Enfin, si, si, si vous êtes chaude avec lui au lit et que vous lui faites des bons trucs à bouffer, il y a 98% de chances qu'il ne vous quitte pas. C'est tout, c'est tout, mais vraiment, c'est tout. Euh, et, et après, bah, comprendre, on va dire, ses, je dirais, ses caractères fondamentaux, c'est-à-dire si c'est un thézeux, Bah, vous, vous aimez bien parler, alors il y a des moments où vous pouvez lui parler, par exemple quand vous dînez, puis il des moments faut pas le faire chier. Pendant 2-3 heures, vous faites autre chose. Donc, essayez de comprendre ces, ces caractères, ces 2-3 traits de caractère fondamentaux, si vous voulez le garder, et respecter, on va dire, ce caractère-là. Si c'est pas trop incompatible avec le vôtre, bien sûr. Mais a priori, si vous êtes des gens ensemble, c'est que ça va. Et à côté de ça, mais bouffe cul, bouffe cul, bouffe cul, c'est tout quoi. C'est, c'est, euh, je vous dis pas de lui bouffer le cul, hein, ça c'est autre chose. Hein. Ça c'est chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais, 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 faites-lui bien à manger. Voilà. Euh, tenez la maison à peu près propre. Euh, et puis de temps en temps, montrez-lui que vous avez envie de vous faire baiser, quoi. Voilà. C'est, c'est pas. Euh tu le, le livre pour comprendre un homme, il fait deux pages. C'est vraiment... Euh, on est vraiment pas chiant. On est vraiment pas chiant. Ah là là, la mauvaise nouvelle, Daniel. Quoi Shakira, elle est libanaise aussi. Ah ouais, elle est un peu libanaise. Oh, c'est pas comme si ça ah, se voyait. Quoi. Ouais. Là, puis, là, je ne suis pas en train de, de, de donner un badge euh, racial à Shakira. Je parle de son attitude. Ce qui se dégage d'elle. C'est ouais, la persécution. L'attitude est colombienne, ça c'est sûr. L'attitude est colombienne. Euh, voilà. Je n'ai jamais vu une Libanaise chaude, ah hein, personnellement. <laughs> Ouais, là, elles sont ouais. toutes mortes, je crois. Ouais, voilà, voilà. Après, dès que la peau est trop foncée, tu vois, Pérou, là, non. non là, 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 là je dis non. Là, je valide Mais pas. Je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est Aztèque quoi. Ouais, c'est euh, Pyramide, Sacrifice, tout ouais, ça. Ouais, voilà, voilà. Ouais, okay. <laughs> tu fais pas une équipe de basket avec ça, quoi. <laughs> euh, du ping-pong. On, on, on fait une pause euh... ben Non, je finis. Je ah, finis, je euh, finis. finis, finis, les, finis. Les, les, les dons sur YouTube. Et on fait une petite pause. Allez. Euh, donc, euh, la question vicieuse, je viens de la poser. Et Chrono revient avec une autre question à 50 euros. <laughs> Les temps modernes qui nous disent... c'est une grande spécialité des latinas, faut le savoir. Mais sur... Pratiquer sur un homme, parce que ça, j'aime pas du tout. <laughs> bon. Pardon. Euh, Chrono, donc, avec un, ouais. autre, euh, un autre don de 50 euros. Allez. Fan de films d'horreur. Oui. Entre parenthèses, Martyr, Ghostland. Ouais. Les Goths, donc les meilleurs. Je te conseille Save the Green Planet, Coréen, sur un conspitaré qui kidnappe un homme riche et puissant car il pense que c'est un alien qui veut détruire la Terre. Oh putain, ça me dit quelque ah, chose. Ah, je l'ai vu, il est, il est excellent. Ça me dit quelque chose. Le, 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 le scénario surtout du film est excellent. Mmh. Tout à fait. Bah, martyr et Ghostland, ouais. c'est deux films du même réalisateur Pascal Logier. Euh, D'ailleurs, récemment, j'ai revu Martyr et... et. En fait, je l'ai plus apprécié que la première fois parce que je l'ai vu un peu comme un cauchemar. Et en fait, si tu vois le film comme un cauchemar, euh, il t'apparaît comme une grande réussite du cinéma d'horreur, en fait. Euh, je reproche quand même au film parfois un jeu d'acteurs un peu inégal, mais qui n'est pas trop le fait du réalisateur, mais bon, qui se voit. Euh, Ghostland, j'en ai parlé. Euh, je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur de ces dernières années. J'aime bien les films d'horreur aussi, ouais. ouais. Ils se ressemblent un peu tous, c'est ça le problème, quoi. T'en as vu un, tu les as tous vus. Hein. Et euh... Je crois que la fin est géniale, mais je ne me rappelle plus du non, mais tout. C'est bon film, il faut que hein. je le revoie celui-là. Ouais, le titre est génial euh, d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, et ensuite, euh, ensuite ensuite euh, Corinne. Bonsoir Corinne, qui nous dit pourquoi F2Souche n'a pas reposté ton livre noir C'est une bonne question. Bah, F2Souche ne m'a jamais relayé en fait. <laughs> Sotarelle ne m'a jamais relayé de sa je vie. Je crois que c'est une question qui dit clash F2Souche. Ouais, ouais, je crois que c'est. Non, non, je ne veux pas me clasher f 2 Souche. j'ai déjà fait. Euh... Il a sa stratégie, en fait la stratégie de Sotarelle c'est euh, en gros je les que les droits d'art qui euh, sont clean et euh, n'ont aucune casserole et euh, sont, ne peuvent pas être diabolisés et accusés de, de racisme. Euh, bon c'est sa stratégie, si tu tapes sur F2SoucheConVarsano il n'y a aucune occurrence de mon, mot, de mon nom, euh, ça va même dans des absurdités quand il y avait eu euh, le débat niveau zéro avec Soral, euh, F2Souche avait quand même titré, histoire de buzzer un peu là-dessus, mais sans me nommer. Genre, euh, il avait dit euh, « Deux, deux youtubeurs euh, se battent sur un plateau télé. <laughs> » N'importe quoi Ils ont pas cité le nom Soral, ils ont pas cité qu'on Enfin, c'est de l'information, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Euh, bon, voilà, je trouve ça un peu ridicule, mais ils font du bon boulot d'information, qu'est-ce que j'ai à en dire Par contre, ils ont, ils ont mis en avant un livre, là, ça ne m'a pas plu récemment. Ils ont mis un livre en un... Oh, je sais pas c'était sais plus quel livre mais c'était de la merde quoi mais bon peu importe Il fait son, son chemin dans son coin moi je pense que le, le rôle de Sautarel c'est pas que qu'il qui devrait faire plus idéologique quand même lui il pense que non bon bah c'est hein. bien que ça existe hein. voilà ça, ça chaque année ça aide des gens à se radicaliser enfin à prendre conscience de, de leurs idées de, de ce qu'ils sont et de l'insécurité en France donc c'est du bon travail ouais. Oh, il y a Delphine dans le chat qui nous dit « Moi, je suis une chaudasse et j'arrive pas à garder un mec. » te, Arrête tes conneries, tu te fous de moi. Tu dois être casse-couille, alors. Parce que si t'es chaudasse et casse-couille, ça c'est un... Eh, écoute, ce qu'on ce qu fait, c'est tu m'appelles. Et... Ouais, je... Attends, je l'ai je, je vu en premier. Entretien privé, voilà, on s'arrange, quoi. Euh... <laughs> Euh, Jadou Petit Coeur ouais. nous dit ta dernière phrase ou penser avant de rendre l'âme oh, vaste question c'est une question euh, trop profonde pour l'ambiance du jour mais euh, je sais pas euh, j'aimerais dire à quelqu'un de mon entourage que je l'aime je pense que c'est difficile de partir sur quelque chose de plus beau à, à mon enfant j'aimerais mourir avec mes enfants près de moi et leur dire que je les aime je vois, vois pas ce qu'on peut faire de plus beau en fait. Et que j'ai confiance en eux et que j'espère qu'ils vivront longtemps, ce genre de choses. Que dire de plus C'est euh... Les mots simples hein, sont toujours les plus beaux. Ok. Uh, sauf, la simplicité et la sophistication ultime. Ah, ah, absolument. Comme absolument. Bah, sauf si mes gosses sont mélanchonistes, mais ça, ça n'a. Mais assis sera mort à ce moment-là, voilà. Voilà. ils seront corbiéristes peut-être, je ne sais pas. <laughs> On a Nicolas Lorenzo. Eh hey, oh plaisir. on voit 50 ron. Hey, merci Nicolas. 50 ROMANIAN, Je sais même pas ce que ça veut dire ron. Mmh. Ron lei. Je sais pas mais. On ne sait pas. Oui parce qu'en en fait pour dire la monnaie locale c'est les lei mais on, a, on dit parfois aussi les ron. Je crois que avant on disait ron exclusivement après c'est devenu lei mais en on a anglais ron en fait. Ouais. Ah tu crois Je crois que c'est en anglais parce que un lei deux lei. Ouais ouais. Ah, je comprends. Alors que Ron, euh, bah, 50, 50 Ron. 50 Ron, c'est 10 euros. Peut-être euh, que je dis une connerie. Nicolas, bah écoute, on espère que ça se passe bien pour toi à Brashoff. Apparemment, il a un voilà. succès fou avec les femmes. Il y là-bas. Je sais pas ce qui se passe. On t'a doxé comme pas possible. Bon, frère. <laughs> on a dit qu'il y avait un brave à Brashoff. Hein, on bah, va donner un... son adresse tout de suite. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, petite pause. Ah, alors, petite pause, on vous met. Euh... En fait, il y a deux musiques, je sais pas si tu peux les enchaîner sans que tu aies à le faire deux fois. Je peux, les... je peux en boucler une, il hein. y en a une qui fait dix minutes. Ouais. Allez, boucle là, va. Boucle là, tiens. <rire> <rire> non, mais on reviendra en mettre une autre au bout de 10 minutes. Et... En fait, on a deux musiques à vous mettre, une de 10 minutes, une de six. On fait un entr'acte, voilà. On vous met la vignette de, du live. Euh, et on revient dans, dans 15 minutes, le temps de se détendre, de refaire un café, et puis euh, tranquillou, bilou. En attendant, bien sûr, si vous avez des questions pour poursuivre cette FAQ, vous pouvez les poser dans le chat, vous pouvez poser aussi dans le super chat YouTube, pour qu'on voit mieux vos questions, mais avec un don même un, minime. Et également sur le site DanielCroiseau.fr, c'est la dernière ligne droite. Battez-vous pour que cette cagnotte explose tous les records de l'humanité. à tout à l'heure, les amis. Bougez pas, on revient dans 15 minutes. Ciao, ciao. On est de retour, on est de retour après cette, euh, cette entracte qui a duré plus de 20 minutes qu'un quart d'heure. On en avait bien besoin. Euh, donc, vous avez entendu en boucle deux fois euh, l'endante de la sonate 21 de Schubert, interprétée par Colin. Euh, Colin est un, un brave et un, un abonné, Super Danny Live, un ami également, qui est pianiste, également interprète, pianiste-interprète et également compositeur. Il fait des fois des variations sur des thèmes connus. Il fait pas mal de jazz, d'impro de jazz. Euh, je vous ai mis un lien vers son, vers son télé, canal Telegram si vous voulez euh, écouter plus de morceaux de, de Colin et on va repartir bah, pour la deuxième partie de cette FAQ euh, qui, est, qui est plutôt chill mais que j'aime bien. Franchement, je, je me sens bien et j'ai pu voir le nombre de questions qui nous attendent là. <laughs> il faut qu'on qu rattrape le retard. Ça va être fantastique. Vous êtes fantastiques les amis et n'hésitez pas à redire, à repartager encore le lien de l'émission même si c'est tard. Toujours des gens qui traînent tard sur les, les réseaux sociaux, euh, ça, ça les envoie vers notre univers et c'est cool. Voilà, j'espère que vous avez profité de cette pause. On est reparti. Café, whisky, tout ce qu'il faut. Donc là, je vais lire les dons sur DanielConversano.fr. C'est la dernière ligne noire. Brique, participer. Ouais, c'est le, c'est, c'est la fin. This is the end. Ouais. ouais. Euh... Donc ça, c'était la question du coca, on en était là. Ouais. Enfin, on a fait les chats YouTube après, et il n'y a plus rien qui est passé. Ok, super. Alors, nous avons Brice, de Bretagne, j'imagine. Ou de Nice. Oui. <rire> <rire> nul, Enfin éd... ouais, ouais, voilà. Euh, un petit don afin de rendre grâce à une partie de l'anatomie de Daniel qui jamais ne flanche sa colonne vertébrale. Oh, c'est beau ça. Merci de tenir bon la barre face à tant de vents contraires, car nous sommes peu nombreux sur le pont. Oui. De la part d'un mousse à un, ouf, à un officier de la cause européenne, Arsène PS, puisqu'il s'agit puisqu d'un direct marathon, je me permets de suggérer trois films dont j'estime qu'ils sont les chefs-d'œuvre méconnus. 1. Le mouton enragé de Michel Delville, de 1974. Il ah, s'agit oui. d'un film dense mais sans lourdeur. C'est une sorte de confession d'un dragueur de Soral, en beaucoup mieux avec 25 ans d'avance. Plus, plus, dr plus dramatique, plus juste, assez cynique malgré tout, mais sans complaisance. Le titre est très évocateur et à propos. Donc c'était... Le mouton enragé donc, ouais. de Michel Delville. Okay. 2. Un homme de fer d'Henry King, de 1949. Ouais. Je l'ai vu celui-là. Un film proche d'un huis clos, comme souvent dans les films psychologiques. Les acteurs sont tous exceptionnels, leur, leur jeu est très crédible. C'est un film très émouvant, très masculin, absolument sans pathos ni moraline. 3. L'île de Pavel Longin. Ouais, C'est un film russe, ouais, qui, est, okay. qui est très étrange. Celui-là se destine davantage au contemplatif, quoique le dénouement ne manque pas de surprise. Il décrit assez bien ce que peut être une saint, un saint chrétien en l'espèce, une sorte de folle en Christ. Je dirais que c'est le plus grand film chrétien de l'histoire du cinéma. La caméra de Lungin lève un voile sur la mystique chrétienne. Aussi, la photo est superbe. L'évangile ouais. selon Saint Matthieu de Pasolini, par exemple, est singulier, plein de qualités, mais il est froid, quasi naturaliste. Son Christ est délicat, supérieur, mais sans chaleur, contrairement au sein de l'île qui est dur, rustre, mais incandescent. Oh, c'est une très belle critique euh, cinématographique. J'ai vu le film il y a longtemps, alors personnellement, pour être franc, je l'avais trouvé surtout ennuyeux. Mais euh, je me souviens de ça. Non, mais je le dis. Mais d'une certaine beauté, beauté formelle. Mais c'est souvent non, ça le cinéma bien. russe. Hein. Il y a un côté, on se dit euh, le cinéma russe classique. Hein. Maintenant, je, je, je suis pas trop ce qui se fait maintenant. Mais Il y a un côté, tu te dis ah, c'est beau, c'est beau quand même. On se fait un petit peu chier. Quoi. <rire> côté <rire> un peu, tu vois, genre non, c'est beau, c'est beau, mais petit peu de chiantose quand même dans le milieu. Euh, des fois, tu devrais faire un mix. Des fois, il y a des esthètes russes, tu aimerais juste les envoyer aux États-Unis pour faire un peu un mix entre le côté script, do script doctor des Américains et leur maîtrise de l'image. Euh, ça match bien d'ailleurs, les trucs comme ça. Par exemple, quand des Mexicains vont faire des, des films aux États-Unis, il y a à côté cette maestria artistique mexicaine qui a un côté d'ailleurs un peu rital. Et puis avec cette, ce sérieux de la production américaine, ça donne souvent des très bons films. Euh, mais oui, oui, des, des bons choix. écoute euh, Merci pour tes conseils. Tu as vu euh, King Jaja ouais, je t'en avais parlé. Bah oui, je l'ai vu, ouais. C'est ouais. toi qui m'en as parlé. Celui-là, ouais. Celui je le conseille. Ouais. C'est pas un film chiant, justement. Euh, alors, euh, bonsoir Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Nous dit Baptiste A. Dans l'optique de modérer la démographie des populations noires, une piste parmi d'autres serait de promouvoir l'accès à l'enseignement supérieur aux femmes africaines. Oui, bah. <laughs> Cependant. Ben, Cependant, cela suppose des investissements dans des pays instables où tout peut être nationalisé du jour au lendemain. L'EPF, ex-école polytechnique féminine, a ouvert cette année un campus à Dakar au Sénégal pour former chaque année entre 150 et 400 ingénieurs généralistes et avec cette année 40% d'étudiantes. Que penses-tu de ces initiatives et faut-il les promouvoir activement en allant y enseigner ou en y investissant de l'argent, par exemple. Merci pour ton travail et tes analyses. Mmh, C'est difficile de dire la stratégie qu'il faudrait, parce qu'il faudrait connaître le... Comment dire Je ne connais pas suffisamment le fonctionnement euh, euh, individuel, euh, étatique des pays africains pour dire comment parvenir à ça, mais je pense que oui, je pense que euh, la modernité amenée en Afrique, et non pas faire venir les Africains chez nous pour, pour les mettre à l'épreuve de, de, de la modernité, mais plus de modernité en Afrique. Plus de modernité en Afrique amène euh, une baisse de la natalité, c'est euh, mécanique. Euh, voilà, plus les gens sont, se rendent compte qu'ils ont moins besoin d'enfants et que on peut avoir une vie confortable sans s'occuper de huit gosses à la fois, euh, plus, enfin, tendanciellement, ensuite la natalité diminue. Donc, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, le problème, c'est que, ben, euh, contrairement à ce que disent ces idiots de gauchistes anti-Occident, il n'y a pas de néocolonialisme. C'est pas vrai c'est-à-dire en fait euh, on traite on, on fait du commerce avec ces pays-là euh, éventuellement parfois quand il y a des intérêts euh, les Américains quand il y a des intérêts supérieurs de leur de leur pognon de leur pétrole ils peuvent euh, faire un gros coup mais je veux dire en fait on, le problème c'est qu'on c'est qu'on ne les colonise plus c'est ça le problème qu ce que je, qu ce que je veux dire par là c'est qu'en en fait s'il y avait vraiment disons un protectorat si les, les pays africains étaient sous protectorat européen mais en fait euh, on va dire dans les mains du pouvoir il y aurait des Européens qui géreraient mieux les pays malgré tout euh, ce serait pas évidemment, on ne ferait pas de ces pays, euh, Prague ou Venise, hein, très clairement. Mais, mais, mais je veux dire, euh, euh, on pourrait insuffler des politiques euh, incitatives à l'éducation, euh, voilà, parlant beaucoup plus à la télévision de la contraception. Euh, et, et à la limite même, même sans focaliser, quoi. <coughs> pardon, un pouvoir blanc en Afrique qui n'aurait même pas une perspective nationaliste blanche, simplement en gérant mieux le pays, <coughs> pardon, simplement en gérant mieux. Mais non. merde et peu une poussière simplement gérant mieux le pays en fait, euh, en fait va changer les comportements des africains et, faire en, et, et ça, ça produira en fait une, une natalité plus basse voilà mais c'est déjà le cas en fait déjà même si euh, l'Afrique se modernise à vitesse d'escargot par rapport à nous, elle se modernise quand même. Il y a quelques pays qui, qui restent vraiment euh, quasiment, euh, enfin, je veux dire, dans le son des, des arrière-bondes, si on veut. Mais, mais, mais euh, tu en as d'autres qui euh, avancent malgré tout. Alors, ils ont toujours 50 ans d'écart par rapport à nous, mais ils avancent. Et c'est ce qui explique pourquoi, euh, je disais, ce n'est pas anodin. On passe d'une natalité en Afrique, en Afrique sur tout le continent africain, hein, de 6,6, de ce qui est énorme, à 4,4 en 20 ans. C'est une baisse qui est énorme. C'est énorme. Donc, euh, les Africains feront toujours un peu plus d'enfants que les Blancs, mais on peut, on peut espérer qu'avec l'arrivée de la, de la technologie euh, au rythme africain chez eux, eh bien, euh, dans, allez, disons, 30 ans, ils soient plutôt à 2,5 qu'à 4,4. Je crois que c'est possible, effectivement. Mais d'ici là, ils voudront tous venir en Europe. Hein. C'est pour ça qu'en fait, la, la, la meilleure stratégie pour moi... enfin. Bon, là, est, on est dans un, là, on est dans l'utopie, hein, mais euh, dans, dans, dans l'utopie politique. Mais pour moi, la meilleure stratégie des Européens, en fait, c'est aller gérer l'Afrique sur place, vraiment, euh, plutôt que de gérer les Africains en Europe. Euh, c'est ce que je crois, <laughs> voilà. Mais bon, là, on est prisonnier des droits de l'homme, des conventions de Genève, des... c'est même pas ça. On est prisonnier, en fait, des. Tu sais, on a ratifié des trucs qui, qui disent qu'on peut plus attaquer des pays comme ça, tu vois. Euh, donc euh, alors que dans le monde d'avant tu vois euh, les Africains nous font chier ici on irait chez eux on dirait bon allez-vous même vous, vous cassez les couilles d'ailleurs attends tu sais pourquoi ça on le dit jamais hein, pourquoi euh, les, les, les Européens enfin en tout cas les Français sont allés coloniser euh, le Maghreb c'est en fait c'est pour arrêter les, les, les barbaresques en fait hein, c'est pour arrêter qu'eux viennent euh, avec des bateaux nous violer nous tuer quoi donc à un moment les, les Blancs on en ont eu marre on dit bon on vient chez vous mais non mais en fait c'est nous qui allons gérer parce que vous cassez les burnes euh, et en fait ça leur pend au nez que, 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 que l'Europe revienne, euh, enfin revienne, c'est pas le mot, mais que, 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 que des pays européens, en fait, en, en, en viennent à, à reconsidérer ce genre d'options. Euh, parce que là, ça, ça suffit. Ça va pas durer 40 ans que des bateaux se pointent en Europe et que les mecs, ils débarquent, quoi. Voilà. Alphonse White, hey. qui nous dit bonjour, Roniel et Dabin. Ok, Sympa. Merci pour la destruction de la ligne rousseauiste de merde sur les deux derniers lives. Les vrais sous-hommes jouisseurs sont ceux qui veulent renverser la société pour se sentir mieux, entre guillemets. Oui. Et d'ailleurs, voici l'avis du surhomme Napoléon sur la race. Ah. Deux petits points. Eh bien, si j'avais été à la Martinique, à Haïti, j'aurais été pour les Anglais parce qu'avant. Tout, il faut sauver sa vie, pardon. <laughs> J'ai très mal lu. J'aurais été pour les Anglais parce qu'avant tout, il faut sauver sa vie. Je suis pour les Blancs parce que je suis Blanc. Je n'en ai pas d'autre raison et celle-ci est la bonne. Rojdi avait raison, vive l'Empereur. Ouais, c'est vrai. Amicalement. C'est une citation qui est assez connue euh, des milieux nationalistes blancs, mais c'est quelque chose qu'a dit, euh, qu dit Napoléon. Euh, alors, chose. Euh, chose oui, ok. Non, c'est pas important ce que j'allais dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Allez, non, 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 mais vraiment, je, 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 je me dédie. J'ai pas besoin de le dire. C'est euh, merci pour ton commentaire. Et hey, étaient pour toi, ces lives. Hein. Toi qui est. D'ailleurs, j'ai emprunté ton expression, les lignes antisociales. C'est vraiment ça, en fait, tout ce qui désocialise, désocialise les euh, les nations est mauvais. Parce qu'évidemment, nos idées doivent pénétrer la société. On ne doit pas se secteur la société pour penser. Mais en fait, c'est un, un côté élitiste. C'est-à-dire que ça aussi, bah ça prend. Depuis que je suis rochedi. Alors ça, c'est une constante, malgré ses évolutions de ligne c'est le principe aristocratique. Mais putain, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi Ça veut dire qu'en fait, ces mecs, ils veulent un monde où il n'y a que des, une petite portion des gens qui ont accès à la vraie beauté, à la vraie intelligence, à la vraie philosophie. Mais pourquoi, en fait euh, Je veux dire, c'est euh, vraiment ce côté. Euh, euh, ils, ils, ils jouissent d'être peu à avoir les mêmes idées en mode on est un club fermé. C'est un peu comme les gens qui, euh, on va dire, vont aimer. Euh, le, le, <laughs> je sais pas le, 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 les musiques indépendantes, pas très connues, euh, et qui en fait vont en faire une théorie. C'est-à-dire qu'en gros, quand un groupe commence à avoir du succès, il, il sort de l'underground, il est moins intéressant. Mais c'est ça en fait. C'est en fait, pour eux, plus ils sont, enfin, moins ils sont à tenir cette ligne, plus ça veut dire que c'est la bonne ligne parce qu'en fait elle est rare, parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle est intellectuellement si haute que les autres n'y ont pas accès. Et je déteste en fait cette façon de penser. Je <laughs> suis en train de boire. T'es cruel. Et comment, je peux, comment je peux te dire que je vais arrêter Enfin, voilà. C'est euh, Raphaël C. Est... Ouais. J'ai été banni du blabla. Raph, s'il vous plaît, j'ai rien fait. Qui nous dit dans le chat YouTube du blabla de euh, le, le, le Telegram, je suppose Ouais. Mais t'es pas banni sans raison normalement. Bah, Raphaël. écoute, ce contact Thorondor euh, Je me défausse complètement. T h o r o n d o r et tu lui expliques ton problème. Voilà, mon ami. T'as pu être banni par erreur. Ça arrive. Euh, Pierre Narbou, Salut. un ultime coup de pouce pour cette fin de marathon. 80 euros. Merci Pierre. Merci à toi Robin pour ta voix suave et ta diction parfaite. Merci à toi Daniel, le digoumeur de cuistre. Merci pour ta pensée pétillante et subversive. Les soirées vont être bien fades à présent, mais l'espoir va demeurer. Vive la France, vive l'Europe et vive l'Occident. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci pour ce message, super. Alors Emma. Bonsoir à tous. Bonsoir Emma. Un petit don pour participer à cette belle initiative. Merci d'exister et que Dieu vous bénisse. Waouh bah ça me fait plaisir. C'est vraiment très beau. On a des gens ce soir. C'est Noël. Attends je réactualise la page. Yes. C'est un petit peu lent. Voilà. Je vais chercher le don prochain. Ce live passe plus vite que prévu, je trouve. Ouais, c'est pas faux. Oh mon dieu, il y en a tellement. <laughs> euh... Voilà. Alors, Alain D. Bonsoir oui. Daniel, merci pour ton travail. Je ne peux m'empêcher de te soutenir. Beaucoup de droits me disent, tu ne peux pas dire race, il faut dire ethnie. Est-ce la même chose Sinon, comment défends-tu ce terme J'y tiens pas tant que ça, en fait, au terme race. Hein. Euh, je, voilà, si j'étais sur un plateau télé, je peux pas te jurer que j'emploierais le mot race parce que, euh, il, 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 il est chargé d'un sens négatif, euh, il effraie les gens un petit peu. Mm -hmm. Mais entre nous ou sur Internet, euh, ou même en famille, je vois pas pourquoi on pourrait pas l'utiliser. Euh, voilà, euh, identité, c'est un mot qui est plus propre. Euh, voilà, c'est écoute. Euh, je, je crois pas qu'il faut que tu te battes pour absolument employer le mot race, mais par contre. Euh, te battre pour insister sur le fait que l'ethnie le a, a un rôle euh, très clair sur le comportement des gens, euh, ça, ça, oui, j'en adore pas. Oui. oui. Euh, as-tu le Bronze Age Mindset Si tu vois ce que ça veut dire. Non. Enfin, je, com je comprends l'âge bron de, de bronze, mais je vois pas. Voilà. Euh... Ou le nouveau livre. Non, as-tu lu le Bronze Age Mindset Moi. Bon ou le nouveau livre d'un auteur complètement différent, Selective Breeding and the Birth of Philosophy. Non, du tout. Je ouais, tu je lis pas anglais donc Je euh... bah, je lis pas en anglais dans le sexe mais j'aurais pu en entendre parler, connaître les thèses à l'intérieur mais ça me dit là ça ne me dit rien là tout de suite. Le titre ouais. me me fait pas vibrer quoi. Mais bon, euh, pourquoi pas Quand je regarde de qui c'est By Bronze Age Pervert Bronze Age Mindset Écrit par Bronze Age Perverte. Putain, ça donne vachement envie. Euh, 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 <laughs> L'état d'esprit de l'âge de bronze. Alors là, j'ai l'impression, rien qu'au titre, j'ai l'impression que c'est du bullshit. Mais après, tu me le conseilles, je vais, je vais me pencher dessus. Euh, Agricole Kern. Oh yeah. De la vieille. Félicitations pour ton travail. Depuis toutes ces années, j'ai commencé à te suivre avec ta magique vidéo sur l'art contemporain. Oh oui, ça date ça. Ouais. Waouh, on est en 2011. Là, ouais, 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 ça a plus de 10 ans. Hein. Post-scriptum, j'ai offert d'art Dard à une nièce. Yes. J'ai offert d'art d'art à une nièce. Yes. C'est un livre. Ah ok. Tu m'as permis parfois de remettre en cause certaines de mes idées et obligé à réfléchir autrement. Merci. Ah c'est très agréable d'entendre ça. Mais moi-même parfois les gens me font changer d'avis. Hein. Euh, donc euh, je veux dire je me place pas au dessus euh, toujours, mais, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ma pensée s'affine chaque année et que je suis de plus en plus cohérent avec mes idées, alors que si vous écoutiez des vidéos... maintenant ceux qui me suivent depuis 10 ans, si vous écoutez des vidéos de moi il y a 5-6 ans, elles vous paraîtront stupides. Il hein. euh, y a des éléments de vérité dedans, mais il y a aussi beaucoup de, de choses qu'aujourd'hui, euh, j'abjure en quelque sorte. Oui. Salut Dany, Jamais203 nous dit euh, « Private ». Ok. Je suis aussi un roulement de tambour. Azouzou, oh là là. Un kabyle irreligieux, plus putain. précisément, qui est encarté chez Zemmour. Quand je pense à tous ces Kabyles patriotes qui m'envoient de la thune, et que dans ces 700 spectateurs, il y en a plein qui le font pas. Ah, il t'envoie ben, un euro. Hein. Oh, il m'envoie un euro, putain. putain. <laughs> Pourquoi on répond <laughs> Avec à ces un pavé quoi. en plus. Quoi. Oh non. <rire> euh, <rire> donc un kabyle irreligieux, plus précisément, qui est encarté chez Zemmour. Bien que radical, ta ligne représente une bouffée d'air frais face à tous les conspits souverainistes qui pourrissent le milieu. L'occidentalisme libéral anticomplotiste est la seule ligne qui a de l'avenir et tu fais partie du peu de youtubeurs sur cette ligne, donc merci à toi. Sois gentil. À part toi et ton trio de chez ADN, il y a également Jean Robin qui a une ligne convenable, mais il est un peu trop manichéen et a une pensée moins subtile que la tienne, donc voilà, pas de question, mais un soutien. Non, non, mais c'est un excellent commentaire. Euh... Mais... D'accord. Non, 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 non. J'ai réfléchi si manichéen est le mot qui, qui correspond à Jean-Robin. Euh... Obtus un peu. Parfois, il est un peu obtus. Mais, euh... mais oui, il est, il est libéral aussi. Et puis, et puis c'est un antiracisme, mais qui est ouvert aux identitaires. Et je trouve que c'est une bonne démarche. Euh, donc voilà. Il m'arrive... Des... Alors parfois, je suis pas du tout d'accord avec Jean-Robin. Euh, mais parfois, il, il m'arrive de l'écouter de dire Tiens, j'avais pas considéré la chose de, ce, de cette, de, de cette manière-là, par cet angle, euh, c'est intéressant, c'est pas faux, c'est même peut-être vrai. Voilà, ouais, je le dis. Mais après, il y en a peut-être d'autres aussi, hein. il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais qui s'affirment pas. Je trouve que c'est un peu, c'est fort dans le milieu nationaliste aujourd'hui de s'affirmer occidentaliste. Et il y, y, y a peu de gens qui le font. On pourrait dire il y a Rage Culture aussi. Hein. C'est un, un excellent magazine en ligne. Je vous invite à le suivre. Hein. Rage Culture, des très très bons articles de fond. Il euh, y, y a de la qualité. Et puis une bonne droite aussi. Hein. Une bonne droite. Alors, c'est des amis. Euh, ils font vraiment du, du super boulot. Euh, c'est euh, une bonne droite.com, je crois. Euh, regardez, vous allez, ça va vous plaire. Euh, chrono dans le chat Et... YouTube. J'attends ton pamphlet Top 3 de tes actrices porno. Perso, ma favorite fut/slash est Cindy Dollar. Check. Et il dit J'essaye qu'on parle de cul encore un peu. Il n'y a pas de souci pour parler de cul. Je te mentirais si je te disais que. Trouve-nous une actrice porno. Que j'ai pas de porno, c'est pas vrai. J'en ai regardé beaucoup dans le passé. Il m'arrive encore des fois de me laisser tenter. Mais très sincèrement, je ne me souviens pas des noms des actrices. Hein. Vraiment, euh, j'en suis pas au niveau de connaissance des pornos où je me rappelle des noms des actrices. Euh... Non, franchement, là, euh, je pourrais pas te dire. En fait, si, si je te disais des noms d'actrices, tu vois, ce seraient des noms d'actrices d'il y a 15-20 ans, à l'époque où je m'assurbais davantage. Donc, je pourrais dire Clara Morgane, ah. tu vois, que je. Voilà, euh, je... Ben, en fait, par exemple, Clara Morgane, c'est une actrice porno -français et, et française et, et en fait, elle, elle avait un joli visage et moi, c'est ça qui me plaisait. Euh, voilà, mais j'ai. En fait, moi, j'ai pas de. Bah, comme tout le monde, je veux des préférences sexuelles. Et si je vais vouloir regarder un film pornographique, je vais, je vais plutôt aller vers un tel ou tel euh, je sais pas type de pratique. Mais euh, j'ai pas de, de fétiche particulier sur une actrice. Donc, euh, c'est pas du tout une manière à me défausser. Mais euh, là, tout de suite, j'ai rien qui me vient. Et j'en regarde pas assez maintenant pour connaître des noms d'actrices. Euh, ça, non, je pourrais pas te dire. Alexandre D. Ouais pas de commentaires. Merci. Laurent M, bonsoir, que devient Asène Occident Mais je ne sais pas, enfin, je veux dire, je ne sais pas, je veux dire, euh, je... Il, ah. il apparaît souvent chez euh, Vincent Lapierre, donc euh, j'aurai les vidéos qu'il fait chez Vincent Lapierre. Euh, il est plus discret sur sa chaîne, et puis il n'a pas eu de bol, il a perdu sa chaîne Twitter, il a perdu son Twitter, il a perdu sa chaîne YouTube, donc il a un peu du mal à remonter la pente. En fait, euh, il a voulu aller euh, vers, un, vers un, quelque chose de plus scientifique. Euh, et délaissé, on va dire le côté euh, militantisme politique. Lui, il pense que ça a pas d'impact vraiment sur le monde. Et donc, euh, naturellement, je dirais que nos chemins se sont séparés. Nos chemins professionnels se sont séparés. Euh, après, humainement, il euh, n'y a pas de lézard. Hein, voilà. Euh, ça fait un moment qu'il qu doit sortir un livre. Je pense qu'il finira par le faire, et, et je serai un lecteur de ce livre. Salut Daniel, merci Robin, merci pour votre travail jovial. D'après vous, jusqu'où le Bitcoin va-t-il monter nous demande Nico D. Alors là, j'en ai aucune idée. <laughs> j'en ai aucune idée. C'est toujours... En fait, si tu regardes les cryptos, c'est récent. Hein, ça ça quoi ça, ça a 15 ans maintenant, pour dire, un peu plus. Euh, non. Le Bitcoin est sorti quand ouais. en 2007 2010 Ouais, mais enfin. Pff. Non, en 2013, je crois. Mais bon. Mais Non, c'est bien avant. Ah hein. oui. oui, oui. Mais, euh, mais bon, bref, ça ça a 15 ans. Et en fait, si tu regardes les courbes, euh, voilà, il y a des courbes. Euh, 2009. Voilà, c'est souvent 2009. en gros stagnant. Et puis après un bull run. Et puis après, après un long hiver. Euh, et puis après un nouveau bull run. Donc il y a une espèce de cycle où tous les deux ans et demi, trois ans, je, depuis l'existence du Bitcoin, il y a une remontée en flèche. Et il, euh, il dépasse son ATM, son all-time high. Est-ce que cette fois, ça va se reproduire Bah. Il n'y a pas de certitude absolue, mais on, les gens qui sont dans la crypto pensent que oui. Donc, moi, pour être très clair, euh, je suis rentré dans la crypto, on va dire, euh, c'était quand euh, C'était pendant le dernier bull run, donc disons 2020-2021. Euh, à un moment donné, j'avais atteint une bonne somme. J'ai choisi de holder j'ai eu dans le cul. Euh, donc euh, après quand c'est retombé parce qu'après quand ça retombe un peu tu te dis bon bah ok mais ça va c'est juste temporaire on attend que ça revienne à comment c'était il y a deux semaines et puis après on retire évidemment ça revient jamais mais ça fait que descendre et après bah là moi je, suis dans, je me dis bah, quitte à avoir quasiment entre guillemets tout perdu -à euh, quitte à avoir euh, vu mais euh, on va dire ce que j'avais de côté divisé par 5, 6 ou 10 bah, autant attendre que ça remonte éventuellement. Donc là, je suis dans une. En fait, je, 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 je hold, voilà. Et j'attends de voir si les monnaies que, que j'ai remontent. Ouais, non, non, mais 2009, c'était dans le chat. c'est inconnu en 2009, en fait. Mais non, bon. mais de nous, non, mais c'est clair. Hein, on ne va pas s'en vouloir de ne pas être rentré dedans en 2009, mais effectivement, c'est sorti en 2009-2010. Ouais. Euh... Euh, ouais. Cherche le truc. Non, non, il n'y a pas de souci. Je sais quoi euh... dire de plus en crypto. Tu sais, de toute façon, je ne suis pas spécialiste. To the, moon. to the moon. Non, mais je dirais que, juste que pour moi, le problème, c'est en fait, tout ça se joue dans la tête. C'est que je ne doute pas que quand il y aura un prochain bull run, on va tous être excités. On va vouloir investir sur 15 cryptos à la fois, dont, dont, dont 14 qu'on ne connaît pas. Ce qu'il faudrait faire, en fait, ne paraît pas instinctif. C'est que intuitivement, on n'a pas envie de faire ça. C'est qu'en ce moment, ça stagne à mort en fait c'est pas motivant d'acheter maintenant puisque ça stagne donc on, mettons on t'achète maintenant et tu sais et fait dans 3, 4, 5 mois bah, tu auras la même somme voire un peu moins et en fait on est tous comme ça on, on, quand on investit on se dit putain allez euh, allez merde j'investis on veut que ça monte mais euh, mais c'est clair que voilà si, 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 si j'avais des balls voilà euh, chaque mois euh, j'achèterais je, je sais pas pour euh, quelques centaines d'euros de, de bitcoin et de Ethereum, parce que il n'y a pas de raison que ça s'écroule totalement et il est très probable que ça remonte et que ça refasse x3, x5 mais psychologiquement, c'est pas évident à... d'être patient, tout simplement. voilà On a ouais, tendance ouais. à faire l'inverse. On, on rentre dedans quand le bull run a déjà commencé, mais c'est déjà un peu tard. Après, ben, quand ça redescend, ça nous fait chier. Après, on retire alors que ça redescend. Voilà, quoi. C'est ces fameux mêmes on se moque des noobs des cryptos, mais on est tous un peu des. Ben, beaucoup d'entre nous sont des noobs des cryptos. J'essaye de me, de me guérir de ça, mais euh, c'est pas évident parce que j'ai pas trop de mentalité d'investisseur. Euh... Euh, voilà on peut pas on peut pas tout être à la fois quoi on peut pas être tout bah, fois. ça monte là hein. Garde, ouais euh... ouais ouais mais ouais mais on sait jamais quand tu es le bull run c'est une fa... parce qu'en fait quand ça monte ça monte très vite c'est à dire que là on, en, voilà, c est, c est... au moment où il y a un bull run c'était parti une semaine en vacances et en fait il y a eu le bull run tu vois enfin il y a eu le bull run. après ça ça peut durer plusieurs mois mais je veux dire la grosse montée tu l'as ratée c'est la merde ça a fait x3 qu'est-ce qui s'est passé mais merde après, tu te dis, bon, bah, j'investis. Et même si t'es en bull run, bien, en fait, à un moment où t'investis, ça stagne. Mais merde, pourquoi ça stagne Ça <laughs> ouais, n'est de... pas un conseil financier. Non, mais c'est de... bah, On a rien dit d'ailleurs. C'est un ouais, truc non, de magicien. On sait jamais. Non, mais moi, très clairement, j'ai essentiellement. Euh... J'ai pas beaucoup de BTC, j'ai essentiellement de l'Ethereum. Ah ouais Ouais. ouais es ah ouais. un bourgeois. J'ai quelques Ethereum. Voilà, quoi, on verra. Ah, si ça fait x10, je vais être content. Mais bon. Où sera-ce voilà, fais, fais voir Ethereum là Je regarde. regarde le FTM, non je regarde. <rire> <rire> tu veux parler de choses qui font mal toi <laughs> euh, Putain, mec, j'ai connu l'Ethereum. Ouais. Euh, début 2020. Il était à 100 dollars. Ouais, ouais, je sais bien, je bien. C'est grosse bien. Maman, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a Ecrevis. J'ai raté ma vie. Il y a Ecrevis qui en 2019 m'a fait un don de quelques centaines d'euros. En Ethereum, <laughs> c'était très bas à ce moment-là. Ouais. Et il m'a dit, mais en fait, le problème, c'est qu'il m'a pas mis un écran rouge, tu vois. Il aurait dû me dire attention, surtout ne le fais pas. Il m'a envoyé ça. Il me dit, oui, je serais toi, je le garderai voilà. Et moi, j'ai entendu un mec qui me dit, peut-être je le garde, peut-être je le garde pas. À l'époque, j'avais pas de rond. J'ai retiré les 900 balles, ah hein? ah hein? voilà. J'aurais gardé deux ans de plus. Ah bah là, ah, un million bah, peut-être. Me... Non, pas le million, non, je mais je ça m'aurait fait ouais. euh, la cagnotte qu'on a là aujourd'hui, quoi. <laughs> ah fin, bon c'est comme ça. C'est, euh, je crois qu'au contraire. Oui, voilà. Je pense que bien au contraire. Recte, comme on dit. Yes. Euh, voilà. Donc ça, on a répondu. Le <laughs> mec il était plongé dans ces graves crypto, t'as raté, t'as perdu le fil, quoi. Non, non, j'ai pas perdu le fil. Thomas L. Yes. Nous envoie un petit don sans commentaire. Un petit don de 42 euros. Oh, merci. c'est pas, pas petit loin mmh. de là. Euh, là il n'y a pas de nom oh, tiens Daniel petit don pour contribuer à l'explosion de ta cagnotte j'avais une question si tu devais retenir revenir dans ton passé ou c'est écrit avec un orthographe euh... approximatif ouais ton T'ON passé ER oh là là que changerais-tu t'aurais pas dû me le dire maintenant j'ai le, <laughs> le visuel de la faute ça me fait mal quoi qu'est-ce que je changerais Oh, tu sais si tu parles là-dedans après. Euh... Oh, j'ai envie de dire un truc un peu léger. Il y a tellement, franchement, de... enfin, c'est très commun. Hein. Il y a tellement de nanas que j'aurais voulu avoir, que j'aurais pu avoir, et que j'ai pas eu parce que j'étais immature et que je comprenais pas les bonnes femmes. Oui, qui t'a changé quelque chose On a envie de changer ça parce que le parcours politique, je le changerai pas parce que je pense que c'est ma force en fait. Euh, c'est ma enfin, c'est ma particularité on va dire c'est ma, ma liberté de tour mon côté électron libre et finalement même mon début qui euh, nazi ben, je le regarde pas parce que il fallait que je me brûle pour comprendre en fait mon vrai moi je pense ça paraît con dit comme ça mais euh, mais de toute façon je pense que dans un parti politique j'aurais pas tenu j'aurais pas tenu j'ai pas j'ai pas les j'ai pas les qualités pour être un politique vous croyez que je les ai mais je les ai pas euh, je parle bien, mais parler bien, ça suffit pas. Il faut des capacités de calme. Il faut des capacités de. de il faut combiner avec les gens. Et moi, je ça sonne ça sonne comme un autoplébiscite, mais je suis trop authentique. C'est-à-dire, euh, voilà, s'il y a quelqu'un qui me fait chier à un moment donné, je vais le dire de manière trop brutale. Euh voilà, je vais trop. J'encaisse, j'encaisse, puis à un moment donné, je, je, je balance vraiment ce que je pense. Et en, et en général, après, ça vexe les gens. Et donc, euh, ça, 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 ça a toujours été difficile pour moi de grimper l'échelle sociale autrement que par moi-même uniquement, en fait. Euh, je suis trop singulier, je pense vraiment, euh, pour réussir dans un cadre, euh, le cadre d'un parti. Donc, c'est pour ça que je ne regrette pas de mettre grillé, en quelque sorte. Euh, voilà après si on pouvait vivre 200 ans j'aimerais bien faire 100 ans de politique et 100 ans euh, juste euh, d'art ça ça me plairait ouais. ouais mon don de clôture pour cette excellente série merci beaucoup nous dit Mathieu Le Brave oui ah, c'est bien ça merci qui se termine ce soir je vais enfin pouvoir repasser mes soirées avec ma femme ah oui <laughs> d'ailleurs je l'ai croisé ce matin dans le salon où je ne l'avais pas reconnu <laughs> <laughs> Hâte de voir les nouveaux projets se, se concrétiser. Maintenant, ma question. Prévois-tu un format court oui. et de vulgarisation de ta ligne Oui. Cela permettrait de la partager plus facilement avec notre entourage, normie. Quand je, peux partager, quand je veux partager une de tes vidéos, 3h30, des références oui. pointues, Mais etc. Ce pas facile d'accès. Ton entretien livre noir a vraiment plu dans mon entourage. Un format équivalent ah. de 30-45 minutes serait génial à chaque fois sur un thème précis. Ciao, tutti si à mon touti, anti-rojedi. Hum. Euh, écoute, tu as raison, ça fait longtemps que ça me trotte en tête. Après, ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas super motivant parce que, si tu veux, quand les gens te rangent dans une case, après, ils attendent de toi toujours le même et non pas euh, l'alternatif, le différent. Et euh, en fait, tu remarqueras sur ma chaîne qu'en réalité, depuis un an, si tu, veux, en fait, si vous cliquez sur ma chaîne YouTube, euh, donc là, par exemple, vous êtes en train de regarder le live, vous cliquez sur Neil Conversano vous avez... Ah tiens, mais ce serait intéressant que tu fasses un partage d'écran si tu veux bien, Robin. Euh, parce qu'en fait, certains ne, sa ne savent pas bien naviguer dans YouTube. Donc, euh, ça paraît con, mais, mais je vais vous montrer parce qu'en fait, euh, voilà. Donc, il y a l'accueil, bien sûr. Donc, ma chaîne, c'est Danny Live. D-A-N-Y Live. Là, je parle de ma chaîne YouTube. Hein, je ne parle pas super Dany Live. Donc, quand vous y arrivez, donc là, vous voyez qu'il y a le, le live en cours, par exemple. Non Ouais, d'accord, mais... Ouais. Dépêche-toi Dépêche-toi Putain euh, voilà. Donc en, en gros, il y a plusieurs onglets en haut, et euh, je pense que c'est pas assez utilisé par vous que simplement en fait vous arrêtez à la page d'accueil. Et la page d'accueil, vous allez voir par exemple plus volontiers les. Voilà, euh, t'es pas sur ma page à moi là. Hein. Il faut que tu cliques sur ma. D'aller voir ça nous. Voilà. Voilà, voilà, là, voilà, tu cliques là-dessus, nickel. Voilà, donc là en haut, vous avez Accueil et en général, vous arrêtez là et vous, et vous simplement vous naviguez en dessous et vous cliquez euh, sur le, les premiers trucs qui viennent. Quoi. Alors que regardez, là, vous avez donc en, si vous voulez en direct, c'est tous les trucs que j'ai fait en direct. Donc là, bien sûr, il y a tous les live espoirs Donc là, c'est facile à comprendre. Et en fait, regardez, il y a l'onglet Vidéo. Et en fait, les vidéos, c'est quoi C'est les vidéos que j'ai faites en différé, c'est-à-dire des vidéos que j'ai enregistrées, souvent d'ailleurs que j'ai montées ou des extraits de, de mes directs. Et euh, alors il y a des exceptions, euh, par exemple, euh, il ouais, y a des, des petites exceptions, mais globalement ça buzz moins en fait. Mais, mes vidéos courtes buzz moins que mes vidéos longues, c'est ça la vérité. Donc euh, je, je, je suis poussé par mon public qui adore mes lives et qui adore mes prestations en live à faire euh, du live. Alors bien sûr je peux euh, m'améliorer sans doute euh, que les gens veulent quand ils ont des vidéos en différé, peut-être qu'ils veulent plus de cuts, plus de, en gros plus d'énergie, plus de rythme dans le montage. Euh, on va on va essayer de s'y donner. Mais euh, mais c'est ça qui me qui, qui me dissuade un peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ma manière de communiquer, c'est le live. Mais par contre, oui, euh, je suis d'accord qu'il faudrait, il, faudrait il, faut, il, faut, il faut de temps en temps, des vidéos, des capsules qui soient pensées pour être diffusées. Euh, bah, typiquement, la vidéo que j'ai faite sur euh, Amélie Nothomb, je pensais qu'elle buzzerait plus, euh, parce que c'est une vidéo de, de 30 minutes, où j'explique euh, par quelques exemples qu'il est dangereux de faire venir des gens qui viennent euh, des, euh, du Népal ou enfin euh, du Népal, euh, du Sri Lanka, du Bangladesh parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes, les pas les mêmes comportements avec les femmes. Bah j'ai dit aux gens, j'ai pensé ces vidéos pour que vous la diffusiez, elle est pas trop longue, euh, bah ça n'a pas tellement marché. Donc il euh, y a quelque chose que je fais mal peut-être que, que j'essaierai de comprendre, mais euh, voilà. Quel est le film de Hitchcock que tu préfères et pourquoi nous demande Victor I. E. Bonne question. Euh, la corde, parce que c'est un film qui est simple, qui est qui est, qui est court, qui est un huit lots que je trouve génial. Enfin, je trouve génial qu'avec une, une telle économie de moyens, on arrive à produire du suspense de la qualité. C'est un film intelligent. Voilà, j'aurais pu en citer d'autres, mais, mais j'aime bien j'aime bien celui-là. Puis j'aime bien les oiseaux. En fait, je trouve ça incroyable d'arriver à faire peur avec un animal qui ne fait pas peur. Euh, C'est là la force et le génie d'Hitchcock. Salut, vous avez parlé de musique électro. Ouais. Et dit qu'on n'était pas trop mauvais en France. J'ai une théorie. Nous, Français, parlons sur une seule octave. 4 en anglais et 11 en russe. Intéressant. Je me suis toujours dit que nous avions notre cerveau qui avait appris à maîtriser de légers changements auditifs. C'est peut-être pour ça que nous sommes bons en électro. French Keys de la French Tech à tous Bah Je, je ne peux confirmer ni infirmer, je ne sais pas, c'est très précis, <laughs> je ne sais pas quoi te dire, mais euh, peut-être, tu as raison. Là où je te donne raison, c'est que je ne sais pas si l'histoire des 11 octaves, mais je trouve que les Russes ont une aptitude particulière euh, à l'apprentissage des langues étrangères. Chaque fois que j'ai fréquenté des, des Russes, hommes ou femmes, euh, j'ai été étonné par la rapidité avec laquelle ils sont capables d'apprendre une langue. Alors, sont-ils simplement moins flémards que nous Peut-être, après tout. Mais, euh, mais je crois pas, je crois qu y a quelque chose de plus ou de moins, je ne sais pas, mais quelque chose qui fait que c'est plus facile pour eux d'apprendre de, des langues étrangères. J'ai regardé la déculotée de Rogi, le décroissant en mangeant mon croissant. Ce serait toutefois mousquetaire de sa part de passer l'éponge pour un fit. Avec Dany, le daron. Ouais, Autrement, que penses-tu de Bernard Lugan, qui fait l'éloge du duel au sabre et qui milite pour sa réinsertion légale Encore une dérive viriliste désuète oui. nous demande Jean Valjean. Oui, oui, je... aucun intérêt. Enfin, j'en je, pense ni du bien ni du mal, euh, lubie comme ça. C'est des, 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 des discours, enfin euh, des des combats d'arrière-garde. Ça m'intéresse pas, quoi. C'est vraiment. Tu vois, c'est aussi pour ça que j'arrête de vivre l'Europe, parce que les gens au fond, les gens attendent que je reçoive des gens comme ça euh, dans l'émission pour accrocher, euh, je ne sais pas, Lugan à mon palmarès. Ça ne m'intéresse pas. Quoi. Ça m'intéresse pas. Si pour moi, c'est le passé, tout ça. C est... C est... C est Lugan, c'est quand même un mec qui parle d'Afrique sans arrêt. Qui... C'est sa spécialité. Oui, mais qui n'arrive pas à t'en dégoûter. C'est-à-dire, en fait, et... comment est-ce possible qu'on ait quelqu'un qui, qui nous parle tout le temps de l'Afrique sans nous transmettre l'émotion principale concernant l'Afrique à savoir que c'est de la merde, voilà quoi. Euh, or euh, moi, et voilà, c'est pour ça que je, finalement ça, de, ça se transforme en clash de Lugan, mais mais pour moi voilà, y a, y a, tout le bon côté de la France et le mauvais est dans Lugan. Bon côté c'est l'élégance, la culture, euh, le, le, le le Je suis sûr que je passerai un très bon moment, un très bon moment à déjeuner ou dîner avec lui, mais à la fin tu dis l'abstraction, what's the point quoi, so what. Tout ça pour en arriver à quoi C'est quoi ta ligne finalement En gros, l'aristocratisme, genre ah ben voilà, il faudrait réintroduire le duel au sabre. Oh là là, mon dieu, mon dieu. Tu serais beaucoup plus subversif euh, si tu disais qu'il faut se battre à main nue contre les racailles, quoi. Ben voilà, c'est serait une ligne dangereuse qui pourrait te conduire en tôle et qui pourrait même euh, en, en, envoyer des gens, des, des, des jeunes au casse-pipe. Mais je trouverais ça plus courageux, tu vois, parce que le duel au sabre contre qui Contre qui C'est un coup à ce que. Euh, un jour, Rojdim propose un duel au sabre. Tu vois, c'est à ça que ça va servir. Ça va servir à des blancs à s'entretuer, tu vois. Ça va servir à rien d'autre. C'est de la pause, c'est nul. C'est tout. C'est la droite française. <laughs> ouais, C'était dur, ça. Ouais, mais c'est la droite française. Est, tout est là, quoi. La, la, la couverture, bon, non, je ne vais rien dire. Si, si, J'ai trop, trop clashé, tard, allez, trop tard. Après, les gens vont dire. Je les gens si vont tu... dire, ils clashent tout le monde. C'est pour ça qu'il tu... qu avait été nul. C'est le part, dernier non. live. Non, allez, allez. allez. Non, non, non. non c'est un ami. Allez, ah là. Et Moi, je lis plus rien tant que tu dis. Allez, fais pas chier. Obéis-moi. Pas de questions. Juste un énorme bravo à vous deux pour ce marathon exceptionnel qui restera dans les mémoires, nous dit Nicolas V. Merci beaucoup. Euh, J'en profite aussi pour faire une dédicace aux braves de Clouge. Hey Clouge en Roumanie, bien sûr. Eh oui, 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 et putain, on a, on a les braves euh, roumains qui se, qui se. Les braves de Roumanie qui se mobilisent, ça fait plaisir. Bonsoir les copains, une petite question pour Dany de Vito L. En tant que mélange franco-italien, est-ce que tu mets parfois de la crème fraîche dans les carbonaras en te flagellant mais en appréciant tout autant euh, je ne sais pas bien je sais pas bien cuisiner déjà tout court mais euh, je cuisine je fais pas la carbonara moi mais euh, je préfère ne pas savoir ce que ma femme fait pour faire une carbonara <laughs> c'est pas une vraie mais c'est une carbonara roumaine c'est pas si mal en Roumanie on mange bien italien bizarrement il y a pas mal de restos en Roumanie italiens on va dire mais tenus ouais, par les Roumains on, on mange bien. beaucoup italien mais bien écoute je pense qu'il y a une histoire logistique c'est que comme il y a beaucoup de, de Roumains qui vont travailler en Italie à un moment de leur vie après, ils créent des liens euh, commerciaux et marchands avec des producteurs de bouffe italienne, et donc souvent dans les restaurants, c'est euh, pas des ce que je dis. Hein, si vous voulez bien manger italien hors d'Italie, Roumanie c'est pas mal. Les Roumains adorent la bouffe italienne, et donc et souvent, ils ont des bons produits. Par exemple, vous allez vraiment manger une vraie burrata ici. Alors le, genre, le paradoxe, non en fait c'est normal, mais la burrata ici va être plus chère qu'en Italie parce qu'elle est importée. Mais euh, moi, ça m'est souvent arrivé de bien manger italien en Roumanie. Bon, voilà, petit détail que je voulais que vous sachiez. Euh de Florent P. Bonsoir Daniel et Robin. Voici un simple don pour ton projet cinéma que j'ai hâte de découvrir. Moi aussi. Même Spielberg a commencé avec un petit budget pour Duel, son premier film. Ouais, mais il a commencé beaucoup plus haut. Hein. <laughs> Question en rapport avec le cinéma. Ouais. Un de mes films favoris est La nuit du chasseur de Charles Lofton. Lofton. On en a parlé récemment. Lofton. Quel est ton avis sur cette œuvre Suggestion pour un live de cinéma. Allez, c'est parti. Les 10 perles du cinéma italien, ça me plairait beaucoup de connaître tes choix en espérant qu'il y ait du Fellini. Bravo encore pour cette série de live, bonne soirée à notre futur Stanley Conversano mmh. amicalement Florent P. C'est gentil, on a, on a parlé dans le live cinéma qu'on a fait dans, dans la série Espoir, on a parlé de, de, la nuit du châteur, de la nuit du chasseur et non pas la nuit du chasseur. <laughs> c'est la version porne. <laughs> non voilà. Euh, ouais, c'est un film magnifique, c'est une leçon de cinéma. Euh, toujours beau, toujours très beau, très beau noir et blanc, très beau cadrage, magnifique. Euh, un conte pour enfants un peu un peu effrayant. Euh, et l'autre question, oui, euh, oui, un top 10 italien, aussi mais ça peut se faire, ça peut se faire. Mais là, je suis dans une hésitation où je te dis, je sais pas si... J'hésite à sortir une chaîne de cinéma, mais faudrait, il faudrait que j'aie assez de temps pour la nourrir. Et il faut que ça ait un sens pour moi. Est-ce est que ça a un sens économique est-ce que ça va vraiment me permettre d'obtenir un nouveau public ou est-ce que par le piège des algorithmes YouTube, c'est juste un public faf qui va voir mes vidéos de cinéma je, je ne sais pas. Euh, donc euh, oui, si je faisais un top 10, j'inclurais certainement un Fellini par, euh, par respect pour l'œuvre entière. Après, c'est vraiment pas mon réalisateur italien préféré. Euh, alors qu'il y a beaucoup de fantaisie, tu vois. Euh, je pense que je me serais très bien entendu avec un mec comme Fellini, mais je, mais je trouve son cinéma trop bariolé, trop excentrique. Il y a pas mal de films de Fellini connus que j'aime pas. Par exemple, j'aime pas 8 et demi. Euh, je j'aime pas ce film. En fait, j'aime je, 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 pas le métalangage de, de ce film. C'est un discours qui. C'est un film sur le cinéma qui parle du cinéma. J'aime pas J'aime pas ces films-là. Euh, mais euh, mais oui, c'est un grand réalisateur, bien sûr. Dans le chat YouTube, on a David Lebel. Merci pour ces lives et surtout pour la vidéo de Doc Dani. M'a fait énormément de bien. À propos de la dépression, bien sûr, le ah, doc Dany. Ok, merci. Merci Robin, tu es un bon gestionnaire de live. Reste auprès de Danny, ne t'enfuis pas. Encore dans d'autres dans pays. Si tu pars, je te retrouverai, nous dit-il. <laughs> Merde, ça fait C'est marrant, peur. ça. Ça fait peur. <laughs> David, encore, nous dit Dany, ma fille serait une bonne future femme pour ton fils. Eh ben Elle a 4 ans. Elle aime les, les animaux et jouer dehors. Pas de dot. Désolé, je suis radin, même si j'ai pas mal de terres et de titres. Ouais, mais t'es à l'autre bout du monde, en fait. T'es au Canada, donc ça va être compliqué. Après, on peut en reparler dans 14 mois. Ouais, ouais, ouais. Je pense que... Mais c'est mignon comme message. Bah, bien sûr. Ouais. si S'il euh, si, si pouvait y avoir... Des... C'est fabuleux, ça... Et c'est le but aussi, hein. le but des Braves, c'est qu'il y ait une... Ai une dirais péré... une péré... Enfin, Que les relations qu'on forge soient pérennes et que, de la même manière que les Braves peuvent se mettre femmes et hommes entre eux pour faire des couples, leurs enfants peuvent faire la même chose. Bah, C'est le principe d'une communauté. Euh, je trouve pas ça du tout étouffant ou, euh, ou comment dirais-je, consanguin, comme diraient certains débiles antiracistes, euh, qui, eux, non, ils sont pas consanguins parce qu'ils se mettent avec des gens qui sont du monde. Mais, euh, mais oui, pourquoi pas. Pour, euh, je suis pas contre le principe des rencontres arrangées. Surtout que les hommes sont niés quand ils sont jeunes et ils ont bien besoin d'un coup de pouce. Donc, euh, merci pour ton message. Chrono nous dit à quand un débat contre Jim Leveilleur ça, ça me dit quelque chose. On me parle souvent de ce mec. Ça fait longtemps qu'il existe. Ouais, youtubeur, euh, ça me dit rien quoi. Le dieu des conspies qui fait 2000 vues en live sur 10 live Donc c'est un concurrent de. C'est ouais. impressionnant, YouTube. 2000 vues sur 10 lives. Ouais. Ce serait super marrant, on veut des duels. Y a-t-il des débats prévus Pff, Non, mais. Euh... Pourquoi pas Je ne suis mmh. pas hyper emballé, mais pourquoi pas Pourquoi pas Je pourrais les proposer. Euh... Ouais, mais tu ne gagnes jamais contre des complotistes en débat direct parce que rien ne convainc les, leur public à eux. Mais, mais c'est du spectacle, je suis d'accord. Ça peut être sympa. C'est comme ce mec-là, tu te souviens qui avait été viré de YouTube euh, Radio-Québec Tu te souviens de mmh. ce gars Un Canadien. Euh, il est viré de YouTube, il va sur Odyssée. À un moment donné, je vais sur le compte UDC, tiens, tiens qu'est-ce qu'il devient 50 000 abonnés sur Odyssée. Je What <laughs> la communauté la plus, la plus enragée du monde, quoi. <laughs> Incroyable. Bonsoir, Daniel. Que penses-tu des francs-maçons Nous demande Alain. Les francs-maçons, tu sais, tout le monde en parle, personne ne connaît. Hein. Donc, euh, j'en pense rien. Franchement, j'en pense rien parce que il y a tellement de maçonneries différentes, il y a tellement de, de, de chapelles différentes, on va dire que c'est comme ça dans la maçonnerie. Le fait que des gens s'organisent en clubs euh, secrets pour s'aider les uns les autres à progresser dans la société à tenir les bonnes places, ça me choque pas. Euh, je pense qu'il faut reproduire ce modèle, on va dire, pour l'idéologie pour nationaliste. Euh, je sais qu'il y a des maçonneries, euh, il y a des loges maçonniques qui ont un, un angle vraiment anti-chrétien, anti-ordre euh, anti naturel, on va dire, euh, euh, qui, qui peut être préoccupant euh, ou dans lequel je n'aimerais pas baigner. Maintenant, ce que je sais euh, de la maçonnerie, c'est que la maçonnerie a de, a de plus en plus de mal à recruter. C'est-à-dire, c'est un, un truc qui est quand même globalement finissant la maçonnerie. Euh, tu vois, contrairement à la, à la Scientologie aux États-Unis, euh, qui, qui est plus ancrée dans le monde moderne, on va dire. Donc, euh, c'est pas mon cheval de bataille principal. En fait, je ne crois pas qu'il y ait un projet. Alors, je crois pas, je ne crois pas au projet maçonnique euh, organisé mondial. Je ne crois pas à ça. Je crois que c'est un gang de gens riches qui s'entraident et qui essayent euh, en fait, d'améliorer leurs conditions d'existence par le piston, essentiellement. Voilà. Bonsoir. Ouais, c'est Cossette, dit... Radio Québec, Radio Québec. C'est bah, lui qui disait euh, Trump, euh, Trump va revenir, quoi. QAnon, quoi. Voilà. 50 000 abonnés sur Odyssée, c'est un truc de fou. Bonsoir, nous dit Stéphane Faucon. Deux courtes remarques. Remarque pour notre Daniel National. Oui. 1. Quand tu as dit précédemment que tout le monde ne peut pas être convaincu à notre cause, c'est en effet assez vrai, mais n'oublions pas qu'en affirmant des choses avec aplomb, charisme et intelligence, on peut déplacer des montagnes. C'est vrai. Et je suis sûr que tu es d'accord. Je suis d'accord. 2. Je pense qu'il est possible à beaucoup d'endroits, même en France, de se créer un cocon blanc. Mmh. Prenons comme exemple mon cas au Luxembourg, qui n'est pourtant pas un paradis blanc. Il n'y a aucun nom blanc dans mon cabinet et presque aucun dans mon village. En conséquence, il m'arrive très régulièrement de passer 24 heures sans voir le moindre nom blanc. Je me suis créé cette situation de toute pièce et je la souhaite à tous les gens comme nous. Je pense que cela doit être un but. C'est un confort incroyable et cette époque de changement démographique. C'est un confort incroyable en cette époque de changement démographique pour rester politiquement correct. Merci pour cette longue série, c'était un bel effort. Eh ben, je suis d'accord avec toi, c'est ça aussi le principe du communautarisme, en fait. Hein, c'est s'organiser pour euh, passer le plus de temps possible entre nous et pas avec eux, entre guillemets, euh, quand c'est possible, évidemment, et quand, surtout quand on ne travaille pas dans les, dans les grands centres urbains. Et je pense qu'une alternative à l'expatriation que tout le monde ne peut pas faire, que tout le monde ne veut pas faire, c'est le white flight, hein, c'est-à-dire le déplacement à l'intérieur d'un pays vers des zones plus blanches. D'ailleurs, je trouve que ça devrait être... Alors, je sais, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, parce que certains ont des bons boulots, ils sont attachés au boulot, ils ont une famille, euh, ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent, je comprends, je comprends, bien sûr, je comprends. Mais euh, je crois quand même que si les blancs avaient... Tu vois, à la limite, je demande même pas aux blancs qu'ils qu disent ce qu'ils qu pensent systématiquement, parce que c'est une question de caractère. Il faut une certaine force de caractère dans ce monde où l'identité blanche et la fierté raciale est très mal vue. Et si au moins les blancs travaillaient à quitter le plus vite possible les villes qui deviennent des trous à merde, mais en fait, les, les, les gens qui tiennent ces villes commenceraient à se poser des questions. Et le problème, c'est que les blancs s'accrochent, quoi. Ils s'accrochent beaucoup, ils s'accrochent beaucoup dans des villes où ils sont en insécurité, où ils sentent que, ils sentent que leurs enfants sont en insécurité. Et, et, mais en fait, il y une question de, science, de sens, quoi. La vie est assez dure comme ça, merde. Vous bossez, vous levez le matin, vous payez des impôts. Euh, vous avez pas en plus à vous mettre cette anxiété de vivre entouré de gens que vous aimez pas. Moi je dis que voilà quand vous êtes dans une ville où, où vraiment ça commence à tout simplement le nombre d'immigrés commence à être trop excessif, vous devez travailler à partir le plus vite possible. C'est une sanction aussi. C'est une sanction du maire qui fait ses choix de peuplement, euh, de l'État. C'est une sanction. Euh, voilà, ça, ça, ça pénalise si tous les blancs on va dire qui font marcher les villes euh, comme ça. Et eh bien en fait ça retire rapidement. L je vais employer ce mot que j'aime pas, mais le système, c'est-à-dire le gouvernement comprendrait que ça peut pas tenir et qu'il faut lever le pied un peu sur l'immigration. Et, et je, je trouve que beaucoup de choses reposent sur la capacité de résilience des blancs, mais une mauvaise résilience, en fait, à accepter un quotidien de merde. Euh, et j'aimerais qu'il y ait plus de rébellion et une rébellion qui se traduise pas par la violence, mais par le retrait. Par le... En gros, non, je non, je veux je, je veux plus. Enfin, Nantes devient euh, Nantes est devenu dangereux, mais non, bah, cassez-vous, cassez-vous, c'est tout. Allez dans une ville qui, de... quitte à avoir pendant un moment un salaire plus bas, faites-le. Faites-le vraiment. Salut Robin et salut Dani. Merci pour toutes ces heures de live. J'ai pris énormément de plaisir à suivre chacune de vos émissions. Voici ma question. Dans quel pays me conseilles-tu d'investir dans l'immobilier Oh, c'est dur ça. À savoir que j'investis déjà beaucoup en France et que suite à mon récent changement de situation... Divorce, car madame ne souhaitait pas avoir d'enfants. Oh. J'ai de grosses envies d'expatriation dans l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est. La recherche d'une femme traditionnelle et de valeur simple va de pair avec mes ambitions d'investir dans un pays où l'immobilier est en train de connaître un boom, ou va connaître un boom, et où le prix reste abordable. Enfin, pourrais-tu m'indiquer si une cellule brave est joignable dans le pays en question le financement des achats immo est aussi une interrogation pour moi, peut en, pour moi peut emprunter à la banque à l'étranger lorsqu'on est français. Les gars, quand il manque des mots, relisez-vous. Désolé pour la longueur et bon repos après cette généreuse série. Nico Merci. Euh, je vais répondre rapidement parce que ce n'est pas ma spécialité. Et de la même manière que je ne peux pas donner des conseils euh, financiers, euh, boursiers, crypto, je ne peux pas te donner comme ça en live devant euh, des milliers de personnes qui vont voir cette vidéo un hein, conseil immobilier <laughs> pur et, et simple. Maintenant, euh, ce que je te dirais, c'est que. Varna. Euh, bah, En fait, en gros, Europe centrale, c'est un bon investissement, mais il faut déjà pas mal de pognon. Le meilleur pays actuellement pour trouver des femmes. Euh, célibataires et qui veulent une vie de famille en Union européenne, c'est la Pologne parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires. Voilà, parce que c'est un pays qui est attractif, donc il y a beaucoup de femmes même occidentales hein, qui maintenant qui vont travailler là-bas. Il y a beaucoup de Polonaises, bon, évidemment. Il y a beaucoup de Tchèques, de Slovaques. Il y a beaucoup d'Ukrainiennes. Donc il y a, je dirais qu'il a un, ce qu'on appelle un sex ratio à l'avantage plutôt de l'homme. Et ce sont des femmes qui, pour l'essentiel, cherchent à être en couple. Voilà. Après, traditionnelle valeur Bon, ça c'est. Euh, C'est un peu un package. Euh, ça dépend ce qu'on entend par là, mais je veux dire, en gros, des femmes qui veulent, qui sont hétéros et qui veulent un mec et deux enfants, quoi. Euh, ben voilà, tu vas en Pologne. Donc là, ça le conseil, il est clair et net. Maintenant, pour l'immobilier, je pense que ça va continuer de monter dans ces pays, mais que l'Europe centrale a déjà connu son boom et il n'est pas certain que le je, on va dire l'explosion d'immobilier qu'il y a eu entre 2005 et aujourd'hui à Prague va se reproduire de 2023 à 2043. Euh, mais je suis sûr que c'est toujours un bon investissement. Cependant, il faut déjà, dit, il faut déjà 200 briques. Tu vois, tu, tu, en dessous de 200 briques, tu n'as pas grand chose d'intéressant. Alors qu'en Roumanie et en Bulgarie, euh, bah, quoi qu en Roumanie, ça a pas mal augmenté aussi. Mais on va dire en Roumanie, tu arrives à. Voilà, avec 70 000 euros. Tu peux avoir vraiment un bon studio dans du neuf, bien placé dans la capitale de la Roumanie. Et ça, je pense que ça va monter doucement. Je ne dis pas que ça va exploser, mais ça va monter. Euh, et la Bulgarie est très intéressante parce que c'est un pays qui est un peu sous-coté au euh, niveau immobilier. C'est un des derniers pays très abordables. Sauf Sofia. Ouais, sauf Sofia. Là, et comme tu l'as dit, voilà, Varna, c'est un bon plan. Hein. Varna, c'est un bon plan parce que c'est... En fait... Bourgas aussi. Je, je, ouais, Vargas, Bourgas, mais Bourgas, c'est peu peuplé quand même. Je crois qu'à Varna, il va y avoir une autoroute. C'est toi qui en avais parlé. Oui, en fait, il y a, il y a plusieurs choses. En fait, je ne comprends pas pourquoi Cinna Varna mafia, est si peu cher. Parce que pour moi, c'est la ville de, autour de la mer Noire de celle que j'ai faite qui, était, qui est la meilleure. Voilà. Euh, parce que, alors, Odessa, il y a plus de jolies ah filles ouais, à Odessa. Odessa hein. Oui, mais il y a plus de jolies filles à Odessa, mais je trouve que Varna est plus agréable. Moi, je trouve que c'est plus agréable. C'est plus mignon, c'est plus cosy. Euh, moi, je préfère. En plus, la Bulgarie, c'est un pays où... Enfin, c'est pas très cher. Tu vois, les consos sont pas très chers. Euh, donc, c'est évidemment une ville de littoral. Donc, c'est magnifique. Il euh, y a deux choses. C'est qu'apparemment, le, le, le port va être agrandi. Donc, euh, il va y avoir plus d'arrivées de marchandises. Donc, la ville va s'enrichir. Ah ouais. Et euh, voilà, et une, une autoroute va être finie, ben, je crois, l'an prochain, hein, entre Sofia et... Varna, de sorte qu'il y a de plus en plus de gens, il y a plus de gens qu'avant. Oula, ouais, feront, ça va exploser là. Qui feront, voilà, qui feront Sofia Varna en bagnole, donc il y aura plus de touristes, même un, de plus de tourisme interne. Euh, donc, euh, et actuellement, je, je sais plus, hein, mais il y a 3-4 ans, tu vois, c'était 1000 euros le mètre carré, quoi. Plus le, le passage à l'euro. Oui, plus le passage à l'euro, mais qui est incertain par contre. Hein. Ah ouais. euh, mais a priori, en 2025, ce serait l'euro en Bulgarie. Euh, mais oui, hein, la dernière fois que je me suis intéressé à Varna, mais j'avais pas les sous à ce moment-là, euh, C'était 1000 euros le mètre carré, quoi. Pour une ville quasiment 100% blanche, en bord de mer, avec un sens de ville historique joli. Euh, putain, franchement. Euh... Non, c'est plus ce prix-là. Mais non, ouais, mais c'est d'accord, mais c'est pas non plus 3000 euros. C'était 55 mètres carrés, je crois, là-bas. Et ça s'est vendu pour euh, 93 000. Ouais, non, mais d'accord. Non, mais d'accord, mais comparé à la France, crois-moi que ça reste très abordable. Oui oui bien, voilà. sûr. bien sûr. Après pour les nanas avec qui cherche aussi. Euh, ouais ouais mais t'inquiète euh, quand t'es propriétaire la dessus tous les nanas, quoi. Alors euh, bonsoir Daniel comment fais-tu pour avoir de si beaux cheveux nous demande Alain. <laughs> Sûrement un troll je sais pas. Euh, hum. On me dit ouais bah je sais pas bah je suis Utilise italien quoi tous je les italien. Non mais j'ai le cheveu ondulé quoi c'est à dire euh, Vraiment à mi-chemin entre le, le frisé réel de l'autre côté de la Méditerranée et euh, le, 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 le blanc du Nord qui a le cheveu plus plus lisse, on va dire, J'ai le cheveux qui ondulent. Mes cheveux sont mieux, ouais, sont magnifiques. D'ailleurs, pas. ils sont purs. Allô, ici la race française d'Amérique. Sûr, bien sûr. Euh, un peu d'écriture québécoise pour le plaisir et une réitération sur ma demande de hier. Ouh là, je vais en chier. D'ailleurs, il me dit bonne chance Robin, entre parenthèses. Ouais. Euh, je ne sais pas de qui c'est, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça vient du Québec. Tiens, v'là encore du clash, décalissez-moi Décalissez -moi, la moi de vidange de jouer Raptor, puis gued... <coughs> Je vais la refaire. Tiens, v'là encore du clash, décalissez-moi la de vidange de jouer Raptor, puis dégadine chercher une licorne blanche bout de vierge. Putain. En tout cas, lâchez pas la patate, les boys. vous êtes bons en Chris Bah putain, <laughs> si c'est vraiment ça le québécois. C'est carrément une langue étrangère, hein. incroyable. <laughs> J'ai pas compris la moitié, mais c'est marrant. Attends, c'est un truc traduction. un mec qui m'a demandé si t'avais pas peur de la vue ou de tirer. J'irais bien au Québec, tu vois. Je, cette autre France, à l'autre bout du monde, ça me plairait bien. Quoi qu y a, est c'est par rapport à la licorne et au raptor, c'est tout ce que je. Oui, compris. je pense que ça. Ouais, ouais. je les vois d'ailleurs, hein. je les vois dans le champ là, dans mon, dans mon champ visuel. Ouais, parce que dans le nôtre on n'a qu'un lion. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui représente ce lion d'ailleurs Je sais pas, juste j'aime bien les lions, oh. c'est majestueux. J'ai acheté ça à Bacao dans un magasin de. C'est le lion nichien. <laughs> non, ça. <laughs> c'est juste joli, voilà. Alors alors, je continue. Euh, Tiens, ça c'est un doublon. Il y a plein de doublons là. Est pour ça qu'il y a autant de. <laughs> Il y a de donc. <laughs> ne cliquez pas voilà. deux fois sur, euh, euh, sur la commande. Euh, on a Corinne. Ouais. isbach Force et honneur. Danny je suis encore sous le choc de l'immense fessée que tu as donné au dépressif ah, rojdi hier soir. C'était beau. Sans oublier ton imitation mémorable de Charles Gave. Vivement <laughs> que tu abordes le sujet de Thaïs et de son travail, entre guillemets, Red Pill sur YouTube. Ah euh... À mon avis. Ces vidéos sont nuisibles, enfermant les hommes blancs dans l'inaction et le ressentiment vers les femmes. Tout au contraire, alors que tu transmets une énergie incroyablement positive. Ceci dit, d'un point de vue croissance organique et marketing, il serait utile que tu produises également, en plus des lives, un format de vidéo bien monté comme Thaïs et les autres influenceurs le font, et qui draine un public plus large, ce qui permettrait de toucher un nouveau public, élargir l'algorithme et prendre... Une nouvelle dimension dans la sphère des influenceurs mainstream de, de droite, entre guillemets. Thaïs, Stéphane Edouard, roche Rushdie, Aldosterone, mm -hmm. etc., etc. Avec des centaines de millions de vues. Tu auras pour cela besoin de scripts structurés, d'un monteur, encore bravo et vive les blancs, vive leur. Ouais, je suis assez d'accord. Les, les vidéos récentes de Thaïs sont super bien montées. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de rythme. Euh, presque trop, de trucs à l'écran, on, on a maté une, une vidéo avec Robin, on, quasiment on a une épilepsie, mais bon, euh, c'est ce qui pleut aujourd'hui. Alors le est extrêmement professionnel. Un ah ouais, peu putain, trop, il doit passer des heures. Euh, donc euh, en fait, c'est monté avec quasiment autant d'apparitions de, de, à l'écran, d'editing en fait, qu'un short, sauf que ça dure 10 minutes quoi, ou un quart d'heure. Ouais. Moi, je suis parfaitement d'accord avec la nocivité, la toxicité même, je dirais, de cette ligne. Je crois l'avoir quand même abordé dans, 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 une, dans un des lives euh, alors, je j'ai pas cité Thaïs, par exemple, euh, je veux dire, dans le titre de, du live. Pas vraiment un clash, mais, euh, mais j'en ai parlé dans, dans le live 8 où je parlais de sexe. Euh, je suis d'accord, je suis d'accord, je trouve ça. Euh... Récemment, j'ai vu un truc ridicule de Thaïs. Attends, ouais, on va y aller. On va y aller sur son mur. On va y aller sur son Twitter. Ouais. Allez, ouais, c'est le dernier live. Hein. Pendant que tu cherches, j'en profite pour dire que je suis monteur vidéo. Ah, oui? Et que si vous cherchez un monteur vidéo, eh, bah, Super Robin est à votre disposition raison de passer commande euh, tiens je me suis sur Twitter j'avais même pas marqué ah bah ben voilà ah bon bah du coup je la clash pas euh, <rire> <rire> non mais bon j'allais juste... dire un truc clashant mais c'était une mauvaise blague je, je ne le dirai pas euh, ouais ça c'est vrai un homme a davantage à offrir à une femme dans sa trentaine une femme a davantage à offrir à un homme dans sa vingtaine c'est vrai bon c'est schématique mais c'est vrai alors, alors c'est. Tiens, je t'envoie ça. 18 octobre. Enfin, je veux dire. Alors que. <laughs> elle parle à des hommes qui galèrent à trouver des femmes sur, sur Tinder. Et qui n'ont pas le. Comment dirais -je, le, la, la motivation ou l'absence de timidité pour aller les chercher dans le vrai monde. Et en fait, alors que déjà, ils sont en galère, donc rationnellement, ils devraient baisser leurs critères, elle leur demande de les augmenter. C'est ça, ça que je reproche. Mais en fait, pourquoi Parce que pour moi, le, le vrai but de Thaïs, c'est pas sortir les hommes du célibat. Parce que, en fait, c'est très simple. Si un homme sort du célibat, il ne suit plus Thaïs. Donc, le but de Thaïs, c'est que les hommes qui l'écoutent restent au célibat et n'aient pas de vraie solution pragmatique pour, euh, euh, pour parvenir, en fait, à, à sortir de cette impasse. Même si elle le fait inconsciemment, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Donc elle, elle dit non, mais moi je, en fait en gros c'est parce que je vous aime que je vous demande d'être pour vous-même d'être sélectif, alors que en fait c'est juste c'est juste logique, c'est même pas idéologique. C'est es célibataire depuis longtemps, c'est qu'il y a des choses que tu devrais faire et que tu ne fais pas et que certainement tu as des critères qui sont trop élevés, donc en fait tu dois baisser tes critères de ce... temporairement pour sortir de ce célibat. Donc elle dit si une femme vous aime vraiment et que vous la traitez correctement, elle cuisinera pour vous. Couchera avec vous. Bon, bah, c'est juste normal d'avoir une femme avec qui on couche. Vous soutiendra dans vos projets. Vous donnera des enfants. Fera le ménage. Vous obéira. Vous obéira en toutes choses. On n'est plus au 19e siècle, Thaïs. Hein, vous respectera. C'est le strict minimum. Sinon, partez. Non, mais bah, enfin, je veux dire. <laughs> Ainsi parlait le prophète Thaïs de Scarf. Oh. Wallah. Et si elle ne t'obéit pas, une petite claque. Qu'est-ce qu'il a est dit le Brut de barameen. Le Brut de barameen, il a dit que c'est la femme. Elle cuisine pas pour vous. Elle couche pas avec vous. Elle vous respecte pas. Elle vous obéit pas. Alors, tu pars. Non, mais voilà. Mais Thaïs, elle est comme ça, du coup. Parce que moi, je suis intéressé. Ah putain, Thaïs, c'est la meilleure femme du monde, quoi. Donc, tu sors avec Thaïs. Elle te fait à bouffer, elle couche avec toi quand tu veux, elle te soutient dans tes projets, alors qu'elle en a plein aussi. Elle te donne des enfants, ou il euh, n'y en a pas pour l'instant. Elle fait le ménage, elle vous obéira. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer Thaïs faire le ménage. Elle vous, elle vous <laughs> obéit en toutes choses, elle vous respecte. Bon, ça c'est la base, évidemment. En général, on respecte mais les gens et qui on sort. Ça, c'est le, le minimum. strict minimum. C'est-à-dire, en fait, en plus de ça, euh, la femme a d'autres qualités, elle doit avoir encore d'autres qualités. Donc ça, c'est la femme de base. Ça, c'est la 2 sur 10, quoi. Parce que la 10, la 10 sur 10, elle te fait euh, la brouette japonaise, elle te pompe le dard en, en deep troth of the groove of wow. the night, tu vois, pendant qu'elle te fait des burgers et qu'avec sa jambe, en fait, elle, elle divertit le gosse, tu vois, en, en, en l'amusant, en lui faisant faire la balançoire, quoi. Waouh c'est pas du tout un truc qui va maintenir les hommes dans leur dans dans leur dans leur leur rêve intangible de femme parfaite qui est en fait en fait si tu rentres là dedans la femme parfaite c'est une meuf de d'anime japonaise tu vois tu sais c'est c'est ça c'est ah euh, euh, je c'était fait ton petit repas maintenant j'étais ici Mais tu voudrais surtout pas te déranger dans ton travail d'accord quand tu es, euh, voilà je te respecte tellement, tu es comme mon dieu pour moi <laughs> Et comme les mecs, ils trouvent pas ce, ce produit dans le monde réel, ils sont là, après, euh, ils se tapent des queues sur les hentai, tu vois. Là, je, moi, je c'est moi, moi, un phénomène que je rencontre souvent. En fait, les mecs, ils veulent une... Euh, en fait, ils veulent une jap européenne, tu vois. Une jap fantasmée, girly, euh, schoolgirl, tu vois. Euh, une geisha. Euh, ils veulent une geisha, tu vois. <laughs> ah, c'est le strict minimum. Tu es mon âme, tu es mon dieu. Sans toi, je ne suis rien. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui bah en fait, euh, je sais pas, je suis au chômage. Tu es parfait, je t'aime, tu es tellement extraordinaire. <rire> <rire> tu es un homme, tu es un phallus. Oh, mon Dieu, c'est incroyable. J'ai t'ai fait des sushis. <laughs> Sinon, quittez là. Sinon, quittez là. Bien sûr, pas oublié. Tellement attends. mieux d'être seul, à se la toucher, à regarder des vidéos d'analyse, quoi. Ah oh, mon Dieu. Bon bah ouais. voilà, hein, je crois que... Je crois que on peut je arrêter je qu de la Non mais par contre je ne ferais jamais un clash ordurier parce que c'est une jolie jeune femme. Donc euh, à un moment donné l'image que ça renvoie et... C'est pas l'image que ça renvoie, c'est juste que c'est... Je, je suis... Enfin je veux dire malgré tout, je suis quand même quelqu'un d'élégant, on croirait pas comme ça. Mais, euh, mais je me permets de, de mépriser les hommes qui me maîtrisent, méprisent. Mais euh, mais je, je, je ne clash pas une femme comme je clash un homme, c'est un principe. Enfin, tant qu'elle me casse pas les couilles, quoi, c'est tout. <laughs> nous dit le luxembourg avec 50 euros encore merci chrono antiquicou jap euh, le luxembourg est toujours très blanc et extrêmement sûr Seules quelques villes périphériques et aussi le quartier de la gare sont atteints donc ça, ouais. ça je pense que c'était une, cita une citation ce ouais. à quoi il répond il faut pas exagérer les gens c'est le meilleur pays de l'ouest quand t'as des enfants euh, je crois qu'il se moque je suis pas sûr euh, ok et il nous renvoie 20 euros, merci encore. Thaïs finira-t-elle avec un mec d'origine indéterminée, puis mère célibataire comme son homologue américaine Lauren Southern Ah oui, qui a fini avec un asiatique. Mais non, elle est... tu sais qu'elle est avec un asiatique, Laura <laughs> Southern. attends, elle, ter... elle se dit plus de droite. <laughs> ouais, ouais. Attends, elle se dit centriste. Non, mais voilà, quand, quand une femme se politise trop, après ça devient le merdier, dans le... ça devient le caca dans le cerveau. Euh... Moi, je pense que ça fait vraiment du mal euh, au cerveau des femmes de, parler, de, penser, de penser trop à la politique. Euh, en fait, ça, ça les éloigne de leur, de leur, de leur, de leur être sexuel, et sensuel. De leur, euh... Ouais, vraiment. Là-dessus, bah, là-dessus, je suis assez, euh, je react, si on veut, quoi. Euh, mais, mais vraiment, je vais vous dire un truc qui est purement vrai, qui n'est pas du tout fait pour provoquer ou pour obtenir de, de, de comment dire de votre part. Euh, dire « roi Daniel, qu'est-ce qu'il balance et tout, parce qu'en plus je sais que je suis suivi par des femmes qui vont écouter ce que je veux dire, mais je vous dis ça sans, je suis rarement intéressé par le discours intellectuel et politique d'une femme. Non mais vraiment, c'est c'est, je ne me souviens pas d'avoir une seule fois entendu une femme sur Internet ou ailleurs qui m'apprennent quelque chose. Non, mais vraiment, euh, qui m'apprennent quelque chose au sens humain, euh, intellectuel, idéologique. Euh, et, et si bien qu'à un, un moment donné, tu te tu, tu dis, bon, c'est un théorème, en fait. Euh, le, je, je veux dire, c'est juste pas le rôle des femmes, en fait. Euh, et et alors, il aurait pu y avoir des exceptions. Et si, et si je tombe sur une femme d'exception, je le reconnaîtrais. Je serais pas le, non, tu es une femme, tu n'es rien pour moi. Mais chaque fois que j'essaye, je me dis, ouais. Non, mais c'est pas terrible, quoi. Enfin, je, je... Je suis pas bouleversé, je suis pas ébloui. Euh, voilà, alors par, par rapport à ce que dit Chrono, alors de toute façon, quand on juge les pays, c'est toujours un rapport à. Ah, Clairement, il vaut mieux vivre au Luxembourg qu'en France, pour plein de raisons économiques, fiscales. C'est vrai que moi, je suis allé au Luxembourg récemment, cette année d'ailleurs. Euh, on, on se sent pas du tout en insécurité. Par contre, dire que ça reste très blanc, c'est relatif. Hein. Alors vraiment, euh, parce que quand tu connais l'Europe centrale. Euh Attends, c'est incomparable. Tu peux pas comparer Luxembourg, Prague, Budapest. Euh, à côté de Prague et Budapest, je parle même pas euh, de Kiev ou de, de la Bulgarie. Euh, moi, je suis allé au Luxembourg, j'ai l'impression de voir des noirs à chaque rue. Hein. Euh, et et, et j'ai vu des noirs à chaque rue. Donc, euh, donc voilà, après, je suis d'accord que euh, les villes comme ça, enfin les, les villes, les petits pays où ça bosse, euh, le niveau de vie est assez élevé, ben, si tu arrives à trouver une place, c'est beaucoup mieux. Il vaut mieux vivre en Suisse que vivre en France, hein, clairement, clairement. Euh, voilà. Bravo, bravo à Robin et à toi pour ce marathon de live qui m'accompagne dans la fin de grossesse de ma compagne. Oh. Spécialement aujourd'hui car vient de naître ma fille. Félicitations. Ah, bravo, bravo. Euh, Guillaume, félicitations. Vous écoutant depuis un hôpital grand remplacé de région parisienne. Ouais. Bah bah tu fais de la résistance. Hein. Par ailleurs je lis. Si nous ne faisons rien de Jared Taylor, comme chez toi, je suis convaincu que la pensée de droite américaine finira par avoir des métastases en Europe, notamment par la culture, les médias et la politique, le meilleur pour la suite. Bah, merci beaucoup. Ceci étant, alors là, je mettrai une... Ah, bravo déjà pour, pour, pour la naissance, viens on te félicite, on est toujours content qu'un qu nouveau bébé naisse dans, dans la communauté. Mais euh, je, je mettrai un bémol quand même à ton optimisme, c'est qu'encore faudrait, faudrait-il que la droite américaine gagne aux États-Unis. Hein. Parce que la droite Jared Taylor n'est pas victorieuse aux États-Unis. Elle, elle existe, elle a le mérite d'exister, elle est tolérée, elle est plus respectée que ne l'est la droite raciste en France. Elle a parfois à la marge une influence sur quelques réseaux conservateurs, etc. Mais en fait, en fait la, ligne la ligne de droite majoritaire aux États-Unis, c'est la ligne conservatrice classique. Hein. Donc, donc, non, clairement, le nationalisme blanc ne l'a pas emporté aux États-Unis, mais j'espère que ce sera le cas un jour. Évidemment, je, je, je souhaite plus que tout. Voilà, merci en tout cas pour, pour ton commentaire. Euh, Sophie, une question pour Robin. <laughs> Merde. Zut, j'y passe. <laughs> Est-ce que tu travailles uniquement pour Daniel ou tu as un autre métier C'est une pute, tu travailles pour n'importe qui. Ouais, ah, bah, à vous, à vous. Au plus au front. <laughs> bah non, je l'ai dit tout à l'heure, monteur vidéo. Sinon, je recommande la lecture de fondation de la psychohistoire okay. de Lloyd de Mose. Qui étudie la motivation dans l'histoire et raconte notamment l'évolution dans l'éducation des enfants depuis l'Antiquité. Intéressant. Certaines pratiques d'antan condamneraient aujourd'hui les parents à un internement à vie. Encore un argument contre le poncif, C'était mieux avant. Ah bah je connais pas du tout, mais ça m'intéresse. Franchement, c'est un... merci pour ce conseil. C'est c'est vraiment très intéressant. Corinne, isbach euh... Est-ce que c'est pas le même Si c'est le même, en double. D'accord. Ou alors je l'ai déjà lu. Non, je pense que c'est un doublon. Euh, Pierre, Pierre-Yves, Pierre-Yves Vergeron nous dit Bonsoir Daniel, bonsoir Robin, j'ai suivi ton clash contre Julien avec attention. Ayant eu rejedi comme porte d'entrée dans la droite aux sphères, cela me désole un peu, mais il faut avouer que sur le fond, tu as raison. Mais j'ai l'impression que tu as jeté le bébé avec l'eau du bain. La droite, se, la droite doit se réapproprier certains thèmes porteurs comme l'écologie. Donc, en vue d'une réconciliation sur ce qui peut n'être qu'après tout une bataille de mots, je propose un nouveau terme. Je lui parle. Euh, non, pardon, je propose un nouveau terme. Lui parle de décroissance. Toi, de croissance. Que penses-tu du concept de croissance raisonnée Deuxième petit truc, si ce n'était déjà prévu un petit mot sur ce que tu penses de la fille Corbière Garrido qui dit qu'elle a aucune tristesse et trouve ennuyant des, des enfants captifs apeurés avant de mourir merci d'avance bonne soirée elle trouve ennuyant j'ai pas entendu cette phrase là de Garrido deuxième petit truc si ce n'était déjà prévu un petit mot sur ce que tu penses de la fille Corbière Garrido qui dit qu'elle a aucune tristesse et trouve ennuyant entre guillemets des enfants captifs apeurés avant de mourir ah, peut-être à propos de... Oui, oui, elle a soutenu la Palestine. Bah, ah, okay. écoute, euh, fille, 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 enfin, fille de, de père et de mère gauchiste, qu'est-ce que ça peut donner en bout de chaîne, hein? forcément euh, Ces gens-là, en fait, ont quitté l'humanité, de cette manière. Hein? C'est vraiment des ennemis absolus. Euh, par rapport à ce que tu disais au début, écoute, franchement, pour moi, en fait, il ne faut même pas théoriser la croissance, la décroissance. Pour c'est... N'importe quelle politique doit promettre aux gens la croissance... Euh, alors après qu'on appelle ça la croissance alternative, la croissance raisonnée, Moi, je pense même je pense même que croissance alternative euh, du point de vue politique c'est mauvais parce que en fait ça sonne altermondialisme et, et les gens qui, les gens n'aiment pas ça. En fait croissance alternative ça sent oh il va y avoir un changement mais un changement euh, peut-être que peut-être je vais pas aimer quoi et non c'est juste normal de il n'y a pas à mentionner la croissance j'ai pas souvenir d'un politique qui qui se sont emparés du mot en disant, vous savez, moi, quand euh, je vais être au pouvoir, il y aura de la croissance économique. enfin Tous, tous promettent ça. C'est juste fou de ne pas promettre ça. Maintenant, je suis d'accord qu'il ne faut, euh, faut pas être droitard sur la question de l'écologie. Il ne faut pas balayer ça en disant, tout va bien. Il y a un réchauffement climatique euh, qui, est, qui, est, qui est prouvé mille fois par dix instituts différents. Mais en fait, euh, c'est de la merde, on va continuer à polluer. Oui, mais sauf qu'il faut dire, en fait, il faut renvoyer la gauche euh, dans les vestiaires en disant... Bien sûr, il y a des problématiques euh, écologiques euh, qu'il faut traiter avec sérieux, euh, mais ces problématiques, ce que ne dit pas la gauche, qui en fait parle tout le temps d'écologie, mais qui au fond n'y comprend rien parce qu'elle ne travaille pas assez ces sujets, ce qui est le problème principal de la gauche. Hein. La gauche vit dans le monde de, des idées, elle ne vit pas dans le monde réel. Euh, la droite vit dans le monde réel auprès des gens, elle connaît les problèmes, les vrais problèmes des vrais gens, euh, les vrais problèmes des gens, euh, les solutions. Euh, eh bien, à, à ce qu'on appelle la catastrophe environnementale, sont des solutions euh, de géo-ingénierie. Ce sont des, des solutions technologiques, bien sûr. C'est-à-dire, c'est l'amélioration des technologies euh, de, de, de filtrage de la pollution, euh, de, 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 de travail sur les nouvelles énergies. Alors, comment va-t-on, par exemple, se débarrasser à terme des énergies polluantes ben, par les nouvelles énergies En fait, par l'amélioration, par exemple, de l'énergie solaire. Euh, en fait, on peut, on peut on, vous savez, j'allais dire, le soleil c'est une source infinie. Ben non, le soleil va s'éteindre un jour, mais, mais tant que le soleil brûle, euh, en fait, l'énergie solaire, elle est considérable et elle n'est pas encore, elle n'est pas très bien employée. Euh, donc en fait, tu peux tenir. Il faut, s'il faut tenir un discours d'écologie, il faut tenir un discours de techno écologie. C'est-à-dire, c'est la technologie et les évolutions technologiques qui vont permettre de résoudre, euh, eh bien les soucis, euh, les, 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 les anxiétés. Et les, et les vraies euh, sources de préoccupation euh, quant, euh, eh bien, en problématiques envi environnementales. Point. On va commencer à dire, il hein, faut revenir à la structure des villages. Mais casse-toi dans un village, je dis. Et puis arrête de, arrête de faire ton Instagrammeuse 5 minutes et tu verras qu'après, quand tu suffoqueras tellement, tu t'emmerderas. Puis alors, ce que j'ai oublié de dire hier, c'est cette idéalisation de la vie en village. Alors Julien, je ne comprends pas. À croire que tu lis que des li poli livres politiques. Tu jamais lu des, des romans du 19e siècle Tu jamais lu des romans du 18e siècle Tu pas remarqué un truc en fait, le village est une structure euh, humaine qui est suffocante également. C'est-à-dire que quand dans un village tu fais un truc, tout le monde le sait, tout le monde te mate, tout le monde te juge. Suffit que tu sois un petit peu différent dans un village, tout le monde te met, euh, tout le monde te met de côté, ou tout le monde a un avis sur toi qui peut être négatif. Donc la vie en village aussi, ça peut créer des névroses. Ça, ça t'en parle pas du tout parce que t'as juste pas vécu ça. Donc toi c'est un fantasme. C'est la vie en village, wow, c'est fantastique, etc. Mais euh, pourquoi les gens aussi ont, ont plébiscité la vie en ville C'est qu'il y a une, une anonymisation qui est agréable en ville. C'est que les gens que tu croises dans la rue, ils ne te connaissent pas, ils savent pas qui ils viennent pas t'emmerder. En fait, paradoxalement, il y a beaucoup de monde, mais, mais, mais dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce climat urbain, tu es, comme un, en fait, tu es comme un fantôme. Mais tu es comme un fantôme, mais il y, 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 y a un plaisir aussi à, à ce que les gens ne mettent pas leur, leur nez dans tes histoires. Ça aussi, c'est l'aspect, tu vois, sclérosant de la vie en village. Ça, Roger, il n'en parle pas. Parce que c'est tout pareil, c'est c'est la droite, quoi. c'est Voilà, on va parler de trucs qui arriveront jamais et rêver à ça jusqu'à la mort. Ah bah ben, génial, votre projet ne m'intéresse pas. Alors, on a... Quack Couek Ben, Salut, tation pour synthétiser. <laughs> Deux points, j'aime bien parce qu'il y a un pavé qui arrive. Pour synthétiser, il faut désarmer de leur arme létale les collabos. Deux points, le racisme. Qui est un droit naturel, comme la misanthropie, qui ne dérange aucune bonne âme, qui en perspective n'est ni mentir, ni truander, violer, égorger, ni même immoral. C'est goûter, préférer, choisir, hiérarchiser, avoir du goût. Il faut. Non plus trembler et s'expliquer platement et inutilement de ne pas l'être, ouais. de manger du couscous une fois l'an, mais redéfinir le concept pour détruire le sens profond enfoncé par endoctrinement. J'ai l'impression que c'est écrit par une IA. <laughs> Deux points. Haine, bêtise, ignorance, peur irrationnelle quand c'est amour des siens et connaissance des autres. Rien ne peut forcer les sentiments à aimer ceci à cela, ceci à cela. Donc là, en fait, allez, mais ceci à cela, c e -C -I à cela, ceci CEUX e u x c i c voilà, à cela, ne pas préférer rien, pas même l'autoritarisme, le diktat ou le fascisme actuel qui vous y force, mais en vain car le réel s'impose. Même le pire des égalitaristes a pitié de ces peuples qu'ils hiérarchise donc tout en bas distribuant des titres exutoires de poètes à des singes savants pour avoir placé deux rimes consécutives en un français approximatif sur un rythme binaire. Chacun chez soi et le racisme de chacun sera bien gardé, il faut, je crois, diffuser le concept pour neutraliser, voire le tourner à notre avantage. J'ai rien compris, C'est incroyable, parce qu'à la fin du message, j'ai pas compris le sens global. Je te, te l'envoie. En parce fait, tu, que tu, que tu dis qu'il faut assumer le racisme en société. Euh, avec quel argument J'ai pas compris l'argument, en fait. Qu'est-ce que... On dirait que tu une solution, mais on l'a pas comprise. Donc, euh, il, je, il je vais le lire à tête reposée et je voilà, te l'apprendrai. On peut le lire, mais on, à voix haute, c'est impossible, en fait. <laughs> <Et> d'accord. <laughs> bon, en tout cas, merci pour ton soutien. Voilà. Et je suis globalement d'accord sur le fait que... Le problème, c'est que... Le que les gens ne fonctionnent pas tous comme... Enfin, on est tous différents, mais si quand quelqu'un te dit que tu es raciste, tu dis ouais, alors tous les peuples sont racistes. Ah tiens, mais il y a un argument, un très bon argument, que je dis, répète pas assez souvent. Regardez, lois antiracistes à travers le monde, vous verrez quel pays a des lois antiracistes. 90% des pays qui ont des lois antiracistes sont des pays européens. C'est tout. Genre, voilà, on, on, est les pays, on, est, on est les plus racistes, on est les seuls pays qui pondent des lois antiracistes. Fin du game. C'est le contraire. Et moi, moi j'arrête les gens, je dis oh, stop, stop, on n'aura pas cette conversation. Et je dis comme ça, on n'aura pas cette conversation. Ou alors, vous voulez vraiment entendre ce que je pense Vous voulez vraiment le savoir euh, On n'est on pas, les blancs ne sont pas racistes, les blancs sont les moins racistes du monde. et C'est la raison pour laquelle ils ont tous ces problèmes. Parce qu'ils savent pas se faire respecter. D'accord Il n'y a pas de loi antiraciste en Afrique. Il n'y a pas de loi antiraciste euh, au Moyen-Orient. Euh, voilà, il n'y a pas de loi antiraciste dans la plupart des pays asiatiques. Il n'y a qu'en Europe qu'il y a des lois antiracistes. Il n'y a, a que nous qui nous prenons la tête avec ces choses-là. C'est tout à fait normal de préférer ce, sa nation, de préférer sa famille, de préférer sa famille euh, euh, génétique euh, aux autres. Voilà, donc euh, j'ai même pas envie d'avoir une conversation là-dessus. Euh, là, je parle dans, dans un contexte social. Après, si vous êtes à si vous n'avez pas envie de vous faire chier, si vous avez envie de convaincre, évidemment, ils font prendre plus de pincettes, mais, mais je veux dire, euh, pff, moi, c'est des discours, euh, moi, je balaye ça. Mais en fait, maintenant, j'ai tellement une flemme d'argumenter que j'en arrive à dire. Euh « Oui, je suis raciste, euh, voilà, euh, c'est normal, mais je ne suis pas agressif, je ne veux pas du mal aux autres, euh, euh, voilà, je préfère juste l'Europe parce que je suis européen, je trouve ça normal. » C'est évident qu'il faut qu'on reste en majorité ethnique, c'est un droit humain fondamental. Euh, pourquoi on devrait, euh, chez nous, en France, en Italie, en Allemagne, se retrouver avec 70% de Noirs et d'Arabes Ça n'a aucun sens, ce n'est pas souhaitable. D'ailleurs, ça ne sera pas bien. Toi-même, tu ne le veux pas. Alors, si, les gens, si le mec, après, il lève le ton, tu dis « Mais toi, tu vis hein, entouré de gens euh, différents. » Tu vis de, tu veux entourer d'immigrés Pourquoi tu ne vis pas entouré d'immigrés ben Non Mais non, ben moi je veux te dire pourquoi tu ne vis pas entouré d'immigrés Parce que tu n'as pas envie, en fait. Donc en fait, il y a un décalage entre ton discours et ce que tu es vraiment. Donc en fait, arrête, arrête de, 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 de ressortir des discours comme ça, prémâché. La vérité, c'est que tu es un Européen, tu as être de gauche et moi de droite, c'est que tu préfères me fréquenter, tu as moins peur de moi euh, que de passer dans un, dans un quartier, euh, ce qu'on appelle un quartier défavorisé, c'est-à-dire un quartier arabe, à 3 heures du matin. Ben, donc en fait, tu es un hypocrite. Donc, alors, il y a aucun problème, tu peux rester un hypocrite, mais viens pas m'emmerder en me disant que moi, je suis un raciste et que je suis un mec pas bien. Euh, voilà, et ne remets sûrement pas en question ma valeur humaine, qui est sûrement supérieure à la tienne. Bon, moi, Quand tu parles comme ça aux gens, après, les mecs, ils ferment leur gueule. Hein. Voilà, c'est tout. Ouais, mais pas d'autres mots. Ouais, je crois qu'au contraire. Hein. Agricole Kern Yeah. Je suis, suis d'accord avec toi, TVL est un naufrage. Parfois, j'ai l'impression que la guerre froide est de retour avec de nouvelles formes d'expression. Une forme de néo-Macartisme n'est-il hein, pas un bon axe, un bon axe d'attaque Oui, tu veux dire hein, accuser comme ça les, les tiers-mondistes, les poutiniens Oui, mais euh, oui, mais, je veux dire voilà, on a fait le diagnostic. Maintenant, on ne va pas répéter pendant dix ans que Tvl est pro-Poutine. Voilà, il se passera ce qui se passera. Si euh, Poutine et euh, la Russie se font repousser à ses frontières, et eh bien en fait, euh, soit ils feront un mea culpa, soit en fait ils feront comme s'ils n'avaient jamais dit ça. Un peu comme euh, les collabos euh, pendant la guerre, qui après, on, voilà, pour survivre ou, ou pour se réinsérer dans la société, ont dit non, bah, écoutez, on, on était pour l'Allemagne, mais pas tant que ça, quoi. Après, on leur sortait des textes, mais attendez, vous foutez de ma gueule. Vous avez écrit des pamphlets contre les, contre les, Juifs, contre les Français, contre les, contre les, Américains, ou encore, mais il y a un contexte. Ils font pareil, voilà quoi. Bonjour, c'est le centre pseudo. Salut. Bonne fin de série à vous. Et une petite question au passage. Que pensez-vous de la jeunesse blanche française actuelle et de son niveau intellectuel Est-il adapté à la modernité avec tous les geeks qui la composent Doit-on voir comme un mal que les jeunes aient beaucoup pour ambition d'être des stars du net en prétendant que le divertissement soit de plus en plus diversifié et important dans le futur, notamment en ce qui concerne le soft power Merci pour tous ces lives intéressants et bon repos d'avance. C'est une bonne question, mais, mais je crois que la situation est pire que ce que vous imaginez de ce point de vue-là. C'est que je pense que vous avez un point de vue franco-français parce que vous habitez en France là-dessus et vous dites en gros les jeunes sont cons, euh, ils sont pas cultivés, Alors, par exemple ils font beaucoup de fautes d'orthographe, ils consomment des produits culturels globalement merdiques. Mais le problème c'est que c'est un phénomène mondial. C'est-à-dire que euh, c'est un phénomène, y a, y a, de ce point de vue-là, il y a une idiocratie euh, dans la mesure où, la, en fait, la, la sous-culture, ce qu'on appelle la sous-culture, en opposition à la culture classique est de plus en plus médiocre et, et de plus en plus abêtissante euh, donc, donc donc par votre conséquence les gens qui les jeunes qui la consomment ben voilà vous, vous les voyez vous dites qu'est-ce qu'on va faire de ces gens là euh, après ils peuvent évoluer ils peuvent évoluer en mieux euh, quelqu'un qui manque de culture peut quand même réussir dans la vie peut quand même bien penser sur certains points mais euh, mais je dire je, j'en pense rien c'est juste c'est juste l'époque qui est comme ça euh, voilà euh, le, 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 euh, Est-ce que, est que tu peux me répéter la question parce que je, je savais quoi répondre et là j'ai un, un, un trou. Euh, J'avais une idée en tête et j'arrive plus à la retrouver. Il euh, y en a deux. Non, il y en a qu'une. Que pensez-vous de la jeunesse blanche française actuelle et de son niveau intellectuel s'il y en a deux Est-il ouais. adapté à la modernité avec tous les geeks qui la composent Doit-on voir comme un mal que les jeunes aient beaucoup pour ambition d'être des stars du net, voilà. etc. Oui, alors ça, ça, je pense que ça c'est autre chose. Que globalement les jeunes et moins de culture G on va dire en fait en gros plus on avance en, dans le temps moins les gens ont une culture classique c'est-à-dire qu'il existait un temps où même, même à la limite si les gens étaient, étaient euh, euh, voilà ils n'avaient pas eu leur bac bah, malgré tout tu leur parlais d'un auteur classique qui connaissait au moins deux noms tu vois et là on, là, on arrive à un moment où effectivement tu as des gens tu leur dis Flaubert ils sont là Flaubert Nanani, le mec c'est un blanc que tu mets en Flaubert enfin juste tu connais au moins le nom enfin tu, tu sais que c'est un écrivain hein, je sais pas hein. ouais Flaubert nique ta mère ouais, c'est un peu effrayant par contre sur le fait que les jeunes veuillent devenir euh, youtubeurs ou tiktokers en fait tout simplement c'est le média culturel sous culturel de l'époque quand je dis sous culturel c'est pas, pas une c'est pas péjoratif hein. c'est juste que la sous-culture, la, la définition de la sous-culture, c'est ce qui n'est pas la culture euh, avec un grand C. voilà euh, donc, donc, mais, mais en fait, les jeunes des années 70, ils rêvaient d'être au cœur voilà, ou acteurs. Donc, c'est donc pas tout, hein, ça s'arrête là. Après, effectivement, les, les sociétés euh, qui parlent un pouvoir fort, nationalisme, mais vraiment au sens fort du mot, euh, poussent la jeunesse vers quelque chose d'autre vers quelque chose de précis et ben effectivement quand tu poses la question aux jeunes ils n'ont ils ont pas des réponses aussi stupides voilà tu poses la question à un jeune chinois il va te dire qu'il veut être chercheur ou qu'il veut être politique ou qu'il veut être astro, enfin, astronaute ou chinois -nôtre, là, je sais plus comment on dit on dit pas astronaute pour les chinois mais voilà quoi <laughs> mais, mais voilà mais en, en occident comme c'est la liberté voilà donc on, on dit aux jeunes ce qu'ils voulaient être ben, ils, ils vont dire ce qu'ils regardent soit ils vont dire sportif soit ils vont dire youtubeur voilà c'est tout c'est pas c'est pas méchant quoi euh, cédric b bonsoir ouais. messieurs daniel je tiens à te témoigner ma profonde gratitude pour ton dévouement envers notre cause merci j'apprécie aussi ton discours optimiste sur les perspectives de l'humanité ouais. à l'attention de tes auditeurs si vous préférez rester dans l'ombre je comprends c'est mon cas aussi cependant nous devons travailler avec acharnement afin de pouvoir soutenir financièrement nos porte-parole Pensez aussi à soutenir Zemmour avec un abattement fiscal de 66%. C'est autant d'impôts que l'État ne pourra pas utiliser pour financer notre remplacement. Ouais. Daniel, je te fais confiance pour relayer ce message de temps en temps. Passez une excellente soirée. Ouais. Euh, dans. dans le 11,70. Ah, donc c'est. Bah, merci, tu es le meilleur donateur de, de, de toute la série Espoir. De tous les temps. Voilà, il, il a débarqué. Euh, il a posé euh, un peu plus de 4000 balles dans le pot. Donc euh, bravo, vraiment bravo à toi, merci beaucoup. Tu dépasses cassé, qui va en faire une dépression nerveuse. <laughs> Mais euh, par rapport à ce que tu as dit, écoute, j'avais proposé dans les dans live, que des fois je fais un peu des brainstorms. Euh, que je partage avec mon public, c'est-à-dire que je réfléchis à voix haute avec mon public, j'aime bien faire ça. Des fois, les gens me donnent des idées aussi. Et j'avais présenté un... Alors, ce n'était pas une théorie, hein, mais c'était une idée. Et je pense qu'elle est bonne. C'est ce que j'avais appelé ça le tandem. En fait, c'est quoi le tandem C'est, en gros, c'est une histoire de parrainage, en gros. C'est-à-dire qu'une personne qui estime que pour des raisons de caractère, elle ne va jamais se mettre en avant et jamais porter des idées nationales, eh bien, en fait, décide de se mettre en partenariat. Euh, militant, professionnel, avec quelqu'un qui, lui, souhaite le faire. Voilà. Donc, en fait, et, et je, je, alors, évidemment, euh, ne peut être parrain qu'une personne qui est, qui, est euh, qui a une certaine aisance financière. C'est pas non plus... Il euh, n'y a pas besoin d'être millionnaire, mais quelqu'un qui gagne plusieurs milliers d'euros par mois. Disons, quelqu'un qui gagne plus de 4 000 euros par mois. Hum, à Paris, il faudrait peut-être dire même plus de 6-7 000. Voilà. Donc, quelqu'un qui peut dépenser, je ne sais pas, de l'ordre de 200 ou 1000 euros, peut-être par mois, pour aider quelqu'un. Euh, ça peut être moins aussi, mais vous voyez l'idée, vous comprenez l'idée. Et en, en fait, ce que je disais, c'est que euh, qu'est-ce que promet l'investisseur ben, En fait, c'est un, une arrivée d'argent régulière euh, en disant, voilà, moi, je ne veux pas ou je ne peux pas m'exposer. Donc, euh, en fait, ma force militante, c'est te donner de l'argent. Et qu'est-ce que promet la personne, l'autre le, le, partenaire du tandem C'est faire quelque chose de cet argent. C'est-à-dire, euh, il, il sans qu'il y ait un contrat, il peut y avoir un contrat humain. cest à en gros, euh, ben voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu es blogueur, ben, euh, tu me sors un article par jour, euh, tu, je veux que, enfin, je, je, je veux, c'est pas, pas non plus, le mec n'est pas ton employé, l'investisseur n'est pas l'employé, mais euh, le enfin, plutôt le, celui qui te soutient, le mécène, n'est pas ton employé, mais n'est pas ton employeur, mais... Mais comme il t'envoie de l'argent, tu, tu lui dois quand même quelque chose. Tu lui dois du travail, c'est logique. Donc euh, voilà, le, le, le militant pourrait dire bah voilà, bah, je, je, je te promets que je vais faire en sorte que mon blog soit plus visité que l'année dernière. On va consulter les chiffres. Si ça avance pas, on va essayer de comprendre ensemble ce qui ne marche pas. Euh, voilà, je vais faire quelque chose de ton argent. En gros, il faut qu'il y ait des résultats, quoi. Mais euh, je pense que si euh, si on fonctionnait un peu, voilà, si les gens qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire les gens de la classe moyenne supérieure pouvaient se le permettre, enfin, ils peuvent se le permettre. Mais si, euh, voilà, ils trouvaient des, des partenaires comme ça de, de, de militantisme, je pense qu'on pourrait avancer. Je pense que c'est une bonne formule euh, parce qu'effectivement, on n'est pas, pas, tous faits pour se mettre en avant. Et puis dans ces sociétés, il y a beaucoup d'emplois, je le sais bien, hein, où pour gagner de la thune, il faut fermer sa gueule. Je le sais. Euh, c'est pas tous les emplois, mais il y en a quand même beaucoup. Et, euh, et je pense que c'est une idée qui a de l'avenir. Ouais. Je la remettrai peut-être au goût du jour dans une vidéo euh, dédiée. Merci à toi en tout cas. Merci pour ce soutien de très très grande qualité. Magnifique. Charles Lee, bonsoir à vous deux. J'ai un, un film intéressant pour toi, Ouais. Daniel. Sex Hunter de 1970 de Yasuhiro Hasebe. Ah, je l'ai pas qui vu. Qui fait partie de la série de films Stray Cat Rock. C'est un film à mi-chemin entre le cinéma d'exploitation et le film d'auteur, dont le thème principal est le sort des métisses au Japon après la guerre. Même si l'antagoniste est motivé par le racisme et que le film pose un regard empathique sur les métisses, la conclusion est ultra pessimiste quant à leur avenir et ils sont symboliquement associés au Coca-Cola. Putain. Bref, un film plus profond qu'il n'y paraît et un des rares qui traite de ce sujet au Japon. Très intéressant. Je connaissais pas du tout, mais le, le titre est facile à retenir. Sex Hunter. Je regarderai. Aurélien, merci à vous deux pour cette Hello. série de live. Daniel, il me, semble, il me semble que tu as cité Spinoza récemment. Oui. Je ne l'ai jamais lu. Que t'a-t-il apporté personnellement oh, Robin, qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ton voyage en Russie Juste par curiosité, je suis moi-même expat là-bas. Ah, intéressant. Il ouais. faut qu'on se mette en contact. Je laisse répondre en premier, comme ça je vais prendre malin. un peu de whisky. Il est malin. J'allais prendre le whisky pour te laisser ah, répondre. Est trop tard. <laughs> Mais euh, je réfléchis. <laughs> je ne suis pas une boîte à réponses. Je ne suis pas Daniel Conversano. Euh, ce qui m'a marqué le plus en Russie, c'est euh, la douceur de vivre. La Dolce Vita, particulièrement à Saint-Pétersbourg. En fait, c'est une combinaison de choses. Déjà, c'est très, très homogène euh, ethniquement. Voilà, euh, un petit Valentine's euh, en, en direct live, sans glaçon je vois. Oui, euh, bah voilà, c'est ce qui m'a... Oh, non, c'est l'autre verre. Moi, c'est le grand verre. Moi, je prends pas des petits verres, de peler. Je veux des grands verres. Ah, stop 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 oh, oh, la main lourde la main lourde italienne <rire> <rire> voilà donc euh, bon sujet délicat parce que voilà euh, la situation est ce qu'elle est en ce moment mais euh, la vie est très est très bien en fait en Russie même en ce moment quoi c'est à dire en ce moment cette année il y a quelques mois quelques semaines euh, c'est clair qu'on ne sent pas que, que les deux pays sont en guerre, les deux pays frères, Ukraine et Russie. Et euh, ouais, l'impression d'être dans une espèce de bulle blanche à Saint-Pétersbourg, l'impression de flotter sur un nuage, bon, après c'est parce que peut-être que j'y étais en touriste. Hein. Euh, cela dit, j'y suis allé un mois et demi, donc j'ai eu le temps quand même euh, de me la jouer un petit peu, j'y habite et euh, bah rien n'est cher euh, les femmes sont magnifiques les gens sont très accueillants ils adorent les français, ils adorent les, les italiens ils adorent les allemands même si euh, nous on les aime pas en ce moment et quoi dire d'autre euh, de ce qui m'a marqué bah la beauté de Saint-Pétersbourg enfin, j'ai pris une claque euh, monumentale je t'ai montré les photos, Daniel on a fait un live ensemble euh, privé sur superdanylive.com Exact. Et euh, je te montrais même les photos en direct quand j'y étais, genre, euh, sur un bateau mouche, entre guillemets. Et t'étais jaloux. Bah ouais, J'étais ah, jaloux de tes matchs Tinder, <laughs> le mec qui m'envoie ses matchs et tout. Et je suis, mais... Euh, eh, moi je suis en Roumanie j'ai deux enfants. Euh, <laughs> et... C'était le diable en fait, quoi. Ouais, ouais, un un rencard par jour facilement sans forcer quoi. Enfin c'est j'ai raté ma vie, c'est ça que tu te dis. Mais euh, voilà, voilà, voilà. Je veux pas trop faire euh, ici la pub de la Russie parce que je sais qu'il y a des âmes sensibles et pas divers, du tout, euh... ça n'a pas de rapport, franchement. C'est à pas de rapport. C'est évident que Mais... euh, c'est évident qu'il y a plus de sécurité dans les villes, dans les grandes villes russes. Alors il y a parfois. Alors le problème de la Russie c'est que parfois elle est l'objet d'attentats. Parce qu'elle est dans le collimateur de certains pays musulmans et puis qu'elle a là aussi des musulmans sur son sol. Il ouais. y a quand même une insécurité qui est, qui est incomparable avec ce qui est en France, bien sûr. Et puis les femmes sont sublimes et puis elles sont en recherche d'hommes. Elles sont sublimes ça, et profondes. Ça change beaucoup de choses. Comme chose. les ukrainiennes. Oui. Ouais, elles, sont, ouais, elles sont globalement assez cultivées. Ouais. J'ai complètement oublié la question que m'a posée le. Ah bah d'accord. Spinoza. Ah, Spinoza. Euh, Spinoza. Ce qui est intéressant, donc essentiellement, par exemple, dans l'éthique de Spinoza, ce qui est intéressant, c'est la construction du livre. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est un livre qui se veut purement logique où, finalement, euh, ça ressemble plus à un théorème mathématique que tu vois se développer devant tes yeux qu'à un livre avec des mots, en quelque sorte. Euh, bon, Spinoza est un déiste et euh, a, une, a une vision qui est... Euh, euh, voilà, donc, pour lui, Dieu est, est la nature, en quelque sorte, ou est dans la nature. Euh, je n'aurais pas que... C'est très arrogant de dire ça, mais je ne dirais pas que Spinoza ne m'a pas particulièrement marqué. Hein. Euh, simplement, euh, il voilà, y a une phrase que je cite souvent de Spinoza, parce que pour moi, elle, elle, elle résume l'esprit philosophique, c'est-à-dire l'attitude philosophique à avoir face au monde autant que c'est possible. Il y a des choses, bien sûr, où on ne peut pas maintenir ce, ce truc-là. La phrase, c'est « ne pas rire, ne pas pleurer, comprendre euh, ». Et, et je trouve que c'est une phrase magnifique. C'est en fait le, un, un vrai sage atteint ce niveau-là normalement, c'est-à-dire une espèce d'une tempérance dans le, dans le comportement, euh, mais, mais c'est toujours quelque chose vers lequel on tend bien évidemment. Euh, si vous recevez une poutre sur la gueule, vous allez pleurer parce que ça fait mal, ou si vous perdez quelqu'un dans la famille, mais, mais, euh, mais voilà, c'est euh, moi c'est pas un philosophe que je conseillerais pour quelqu'un qui s'initie à, à la philosophie parce que c'est quelque chose, c'est un philosophe assez rigide, euh, c est, c est, voilà, moi je conseillerais un peu de, un truc avec plus d'émotion, quoi, plus d'âme. Tiens, voilà. je, vais, je vais me mettre en contact moi-même avec euh, l'expat là-bas. Bah vas-y, attends, fais hein, bien sûr. S'il me le permet. Euh, Alain, encore. Merci Alain. Salut euh, Alain. Alain D. Bonsoir Daniel. Le progressisme technologique et le croissantisme sont-ils compatibles avec le catholicisme? Euh... T'as trois heures. Non, mais c'est une question intéressante. On a un auteur qui pense que oui, et qui nous a quittés il y a quelques années, qui est euh, Maurice Dantec. Maurice Dantec développé dans son. Alors, on doit. Euh, en fait, Maurice, il faut rendre hommage à Maurice Dantec, c'est que, à peu près d'ailleurs au même moment que Guillaume Faye, à la fin des années 90, il a dit bien avant beaucoup de gens que euh, l'islam allait euh, poser d'énormes problèmes en France et il s'est cassé au Québec à ce moment-là. À ce moment-là, la politique du Canada n'était pas, pas trop immigrationniste et puis le, le Canada était, était bien préservé. Euh, donc, clairement, il a été content de son choix. Bon, après, il a une vie un peu délinguée un peu alcoolo, dépressif, etc. Donc, il est mort euh, très jeune, avant 60 ans, je crois. Et, euh, et en fait, dans, dans ses livres, il, il développe une espèce de philosophie. Alors, c'est est un, un occidentaliste, ça qui est intéressant chez, chez Dantec, affirmé. Il développe une espèce d'idéologie cathoscientiste intéressante. Il arrive, à, il arrive à faire rimer la morale catholique avec euh, les sociétés modernes. C'est un petit peu... Euh, c'est un petit peu bricolé comme idéologie, mais après tout, pourquoi pas C'est pas, pas plus con qu'autre chose. Qu chose. De toute façon, je veux dire, on, on est déjà dans un monde où euh, croire en Dieu et à l'intervention de Dieu sur Terre aujourd'hui, c'est un pari. C'est un pari euh, qui, que, que tout le monde... qui semble pour beaucoup incompatible avec l'aspect très rationnel des, des, euh, des choses dans, dans la vie courante. Voilà. Mais, mais, mais je dire, si, si ta foi a survécu à l'époque moderne, elle survivra à tout. Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. Si, si tu n'as pas été convaincu que euh, par le simple fait qu'on utilise plutôt la technologie médicale, maintenant j'appelle ça la technologie médicale, c'est la médecine tout simplement, hein, qu on utilise, quand on est malade, on utilise plutôt la médecine que la prière. Pour moi, pour moi ça c'est enfin, quand j'ai compris ça je me suis dit mais en fait je me suis dit, la foi est un scam en fait la foi s'insère toujours dans un, dans un manque de, en, de entre, entre deux choses qu'on ignore quelque chose qu'on veut et qu'on qu ne sait pas comment atteindre par exemple la guérison et donc à ce moment là on va, on va, on va produire un truc on va chercher quelque chose qu'on n'a pas dans le monde réel et qui est la foi. Donc, on va regarder vers le ciel. On va, on va appeler euh, finalement euh, dans le vide, en hein, quelque sorte. Euh, et qu'est-ce que je disais et, 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 et si, en fait, toi, tu as réussi à conserver ta, ta foi malgré, en dépit du fait que tu, euh, alors même, je dirais, alors que tu vis dans ce monde-là qui est ultra technologique, bah, bah alors, toi, pour, un, pour toi individuellement, ça marche, c'est tout. Euh, c'est tout, voilà c'est ce que je crois mais après il y a des valeurs que je trouve très belles dans, dans le, le christianisme euh, la charité je trouve que c'est une très belle chose euh, je suis pas d'accord avec, euh, avec Nietzsche sur le fait que la pitié c'est plus compliqué que ça mais, mais voilà je, je, je n'ai pas de mépris pour les gens qui éprouvent de la pitié pour d'autres gens euh, la pitié est un sentiment humain mais il faut pas le mettre au centre en fait, la pitié doit pas être en numéro un ils ont tout ça en fait euh, c'est d'abord vos intérêts qui doivent primer avant la pitié euh, mais mais la pitié et la charité sont de belles choses en fait. Voilà. Moi moi je vous dis sincèrement Sparte, Sparte ça me fait pas bander. Hein. Euh, c'est le côté marche ou crève ça me fait pas bander du tout. Hein. Et d'ailleurs qu'est-ce qui, qui qui a gagné Est-ce que c'est la, la, la démocratie grecque Est-ce que c'est est-ce euh, que c'est la civilisation Est-ce que c'est Sparte Mais non Sparte a Sparte a perdu. Voilà. C'est bien défendu mais a perdu parce que il y avait un manque d'équilibre c'était trop basé sur la violence trop basé sur marche ou crève euh, et, et ça ne me fait pas du tout du tout bander je ne pense pas du tout que ce soit une, une société idéale hein. absolument pas bonsoir Aurélien merci à vous deux pour cette série de live Daniel ah merde j'ai déjà c'est celle sur euh, Spinoza pardon ok euh, bah du coup ils en double aussi dis donc il bonsoir se passe. Non, ouais. Il y a du double. Ou alors c'est moi qui vois double. Bonsoir tous le... les deux. Concernant les souverainismes et leur anti-américanisme primaire, nous dit Max IDF, un exemple de la vie de tous les jours suffit à démontrer, à démontrer leur conviction électorale complètement foireuse. De petits points, il suffit en effet de demander à n'importe quel Français, moyen non politisé, quel pays la personne a visité, ouais, voire préféré, lorsqu'il, elle, a voyagé en dehors de l'Europe. Et 9 fois sur 10, je caricature à peine, il ou elle vous citera souvent avec fierté les États-Unis. Bien sûr. C'est à croire qu'ils ne fréquentent pas le réel. Ils pensent que leur logique est celle que partage la majorité des gens. Frexit, sortie de l'euro, de l'OTAN, etc. Alors que c'est l'inverse. PS, les locaux de TVL ne sont pas dans Paris, mais dans 84 C'est bicêtre, mais c'est pas loin. PS2, à, à propos de phénomènes mystiques, il est arrivé quelque chose de très troublant et relativement récent dans ma propre famille que je peux raconter et certifier à 100% pour les intéresser ok Nous sommes intéressés ah, mais mais ça n'est pas expliqué. il le révèle pas <laughs> le suspense euh, démoniaque euh... ouais alors sur, sur, ouais, tout à fait c'est un, un très bon exemple. Bah, c'est comme Gaspard Pouss hein, qui disait voilà quand clonc -clonc le mur hein, il a bien mouché le plateau ce soir-là c'est une blague mais il avait raison euh, quand, quand le, le, le rideau de fer s'est chuté euh, c'est pas les gens de l'Ouest qui sont les vers l'est hein, c'est le contraire c'est un peu la même chose par rapport à ce que tu dis il euh, y a un, un autre exemple c'est euh, voilà Papacito, il, il valorise toujours les dictatures tu sais euh, Kim Jong Un ça il a, il a de la couille ça la ça après franchement il faisait le job hein, quoi qu'on dise bon il quitte la France il va où il va en Espagne on... Ouais, tu vois c'est non mais voilà enfin je veux dire euh... ça a de la couille un peu trop pose à 100% tu vois c'est bien sûr bien sûr les souverainistes eux-mêmes je suppose consomment beaucoup de produits culturels américains euh... voilà mais parce qu'en fait ils ont ils ont ils ont un, un ressentiment le souverainisme c'est l'idolâtrie de l'État français. Je dis bien de l'État français, c'est normal en tant que Français de préférer la France. Mais l'idolâtrie de l'État français en tant qu'administration, en tant qu'entité administrative. Et en fait, tu, il ne supporte pas que la France soit passée numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 entre le 19e siècle et aujourd'hui. Et ils n'arrivent pas à guérir de ça. Et c'est pourquoi, euh, alors, quand ils ne sont pas tout simplement payés par des, des forces étrangères, enfin, des, des nations étrangères, bon, ça c'est pour ceux qui pèsent vraiment beaucoup, euh, eh bien, en, en fait, euh, ils ont tendance à survaloriser. Par exemple, tous ces gens, vous remarquerez, ils sont fans absolus, vous savez, du, du Moyen-Orient, genre, Liban, euh, euh, Syrie, ils te parlent toujours. fait, quand ils te parlent de ces pays, tu l'impression qu'ils te parlent. De, 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 de la Nouvelle-Rome, quoi. Genre une élite incroyable, un raffinement de mon cul, du Moyen-Orient, de mes couilles. Et, et, et en fait, pourquoi Parce que, comme ils sont sur une position non alignée, c'est-à-dire anti-américaine, ils se font inviter. N'oubliez pas ça. Ils se font inviter. Euh, ils, ils sont même pas, Je ne dis pas qu'ils sont payés par, la Liban, par le Liban, la Syrie ou la Libye ou quoi que ce soit, mais ils sont invi invités comme des ambassadeurs. Oh Monsieur Asselineau, oh Monsieur euh, l'intellectuel, oh Monsieur l'écrivain, venez ici. En fait, en fait, donc ils sont accueillis à l'aéroport par un interprète. Ils font la visite de la ville. Ils voient tout le meilleur, etc. Donc en fait, ils, ils sont, ils sont reçus à, à la hauteur qu'ils croient mériter. Et à côté de ça, et, et donc ils en nourrissent après un ressentiment contre les États-Unis parce qu'ils disent voilà ce que nous volent les Américains. Ils nous volent cette, ce, ce prestige que la France a perdu euh, parce qu'ils sont passés numéro un. Et ils retrouvent euh, cette, cette manière d'être vu comme, comme, comme un, un être d'exception par, par des pays shit-walls où, euh, évidemment, on les accueille parce qu'ils sont les seuls à le soutenir. Alors moi, si je commence à. Mais, mais je déconne pas, si je commence en fait à, à dire du bien du Liban, de l'Irak, euh, j'en sais rien de quoi, même de, de l'Iran, voilà, je, dis, je commence à dire du bien de l'Iran sur, sur 14 000 vidéos. Euh, à un moment donné, je vais être invité à Téhéran et je vais être bien reçu. Et peut-être même que je vais baiser une meuf, euh, évidemment pas en secret un peu, hein, mais une meuf un peu coquine qui n'a qui a pas vu un occidental depuis 10 ans et qui va être euh, envoûtée par mon, mon charme italien d'écrivain de, de, euh, pro-Iran. Euh, et, et après, je vais revenir et je vais, je vais, je vais prendre un article genre l'Iran, euh, ce pays. Euh, voilà, ce, ce pays où, où les valeurs traditionnelles sont toujours respectées. Ce pays non-aligné par excellence, patati patata. C'est ça les souverainistes, en fait. Ils ont fait le choix du tiers-monde. Parce qu'en fait, quand tu, quand tu lèches le cul du tiers-monde, ça lui arrive tellement pas souvent qu'il qu est content. C'est tout. Ça s'arrête là. Merci, France euh, France G, pour tes 40 euros. Merci beaucoup. Sans commentaire. Merci, patron. Autre commentaire, autre don, je veux dire, de 40 euros. Ne dis pas mon vrai nom s'il est inscrit. Ok. Un petit don de l'ouest de la Pologne pour la dernière. À la prochaine, Smiley. Merci beaucoup. Merci, l'ami. On a beaucoup de Braves en Pologne. Hein, pour ceux qui. Euh, la question ne m'a pas été posée, mais euh, j'y réponds d'avance. Si vous souhaitez vous expatrier en Pologne et que vous voulez bénéficier du soutien de la communauté des Braves, je vous invite à adhérer euh, aux Braves. Donc, sur le site lesbraves.org, euh, rubrique euh, adhésion, rejoigne, rejoignez-nous. Euh, voilà, suivez le, le processus, vous n'allez pas, pas le regretter. Euh, J'arrive chez mes parents avec ma femme et mes deux gosses, nous dit Frédéric P. Fin okay. de soirée, tout ce beau monde va se coucher. Moi, je lance YouTube sur la télé du salon. Je tape C-O-N-V et tu es le premier dans les suggestions. Ah, sympa. J'ai pris en photo la télé pour preuve. Pourtant, ni ma mère ni mon père ne te connaît. Pour mon père, c'est sûr. Comment expliques-tu cela Connais-tu ma mère bah, Bonjour de Normandie. Bah, probablement que tu avais déjà euh, tapé mon nom dans cet ordinateur. Euh, voilà. Non, non c'est une télé. Ah, c'est une télé. Ouais. Bah, écoute, il euh, faut croire que maintenant, euh, je suis soutenu euh, comme je soutiens Israël. Euh, voilà, tout se combine. Tu connais sa mère. Et je connais, je connais ta mère. Je connais toutes vos mères très personnellement. <laughs> je Merci. connais toutes vos mères et c'est toutes des cinq. <laughs> selon le vieil ouais. adage vos mères étaient des cinq. merci Luc G euh, ensuite Fauderche j'habite à Grenoble quel là, drôle de mes pseudo mes condoléances et il y a dans la région des endroits publics où l'on peut déposer des livres pour que n'importe qui puisse les lire ouais, ouais par ouais. exemple dans un parc et les reposer pour que des suivants puissent les lire ouais okay, bien, sûr. Sûr, bien sûr sympa si je dépose par exemple un de tes <laughs> livres comme celui de Jared Taylor penses-tu que ça peut bah t'aider à te faire connaître à faire connaître nos idées, ou crains-tu que ça puisse faire des bad buzz qui se retournent contre toi Ah oh non, ça fera pas des bad buzz. Oui, je sais, j'ai des idées à la con. On pourrait mettre des livres dans les bibliothèques d'universités, et les, et les bibliothèques et les médiathèques. Disons que, au-delà d'exprimer ses idées face aux gens qu'on côtoie, je me demande quels sont les autres moyens qui permettraient d'accélérer la connaissance de, de nos idées sans attendre de se faire casser la gueule pour commencer à comprendre ce qui se passe. Euh, écoute, si, je pense qu'il y a une fausse bonne idée. Ce n'est pas, pas non plus... Enfin, rien de dangereux, hein, ni pour toi, ni pour moi. Euh, ça ne me porterait pas du tout préjudice, en aucun cas. Mais c'est un peu une aiguille dans une botte de foin. Hein, C'est-à-dire, est-ce euh, que ça va tomber sur la bonne personne qui en fera la bonne interprétation, qui ensuite va être conquis par nos idées Tu vois, assister c'était une opération nationale... Ben, tu vois, voilà, voilà le genre de choses qu'on pourrait faire. Voilà, voilà. De toute façon, quand tu quand as de l'argent, tu peux tout faire. voilà euh, tu, tu as de l'argent à gogo euh, voilà si, si, si je pouvais me permettre de, de perdre entre guillemets l'équivalent l'équivalent de 4000 livres imprimés c'est à dire en fait je, je ne prends non seulement je dépense cet argent je ne le retrouve en rien donc c'est je sais pas ça me coûterait euh, allez disons je sais pas 6 8000 euros d'impression euh, et en fait euh, ah, tu as 4000 bouquins bah là, tu peux les distribuer bah, là, tu, tu, tu peux envoyer des, des espèces de ninja euh, nation pour foutre ça dans les bibliothèques, pour foutre ça dans, dans les lieux que te, dont tu as parlé. Et là, il pourrait y avoir une espèce d'impact, une espèce de buzz euh, qui pourrait même servir au livre. Mais juste, une, voilà, là, c'est vraiment une bouteille à la mer. Mais, mais pourquoi pas hein, Tu peux le faire. Hein. Je vois tout à fait des lieux dont tu parles. Tu peux tu peux le faire. Ça va être intéressant. Mycroft. Eh hey. Avec 60 euros. Purée, Merci, Mycroft. Mycroft. a envoyé beaucoup d'argent. Coucou, hein. peux-tu finalement nous expliquer la blague roumaine du cimetière euh... C'est inexplicable. C'est un des mystères de la vie. Si, 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 j'ai fini par le comprendre. Hein. Je finis par la comprendre. Mais en fait, est, elle n'est pas drôle, la blague. C'est pour ça que vous avez pari. C'est <laughs> en fait, <laughs> bah, elle oui. est compréhensible parce qu'elle parce qu en dit beaucoup sur l'état euh, d'esprit roumain. Alors, la blague, je refais la blague du squelette. Euh, Peut-être que ça marchera mieux, moi, si je la raconte moi. En fait, c'est un gardien de cimetière qui, euh, qui fait sa tournée. Enfin, sa tournée qui fait sa ronde, pardon, n'importe quoi, qui fait sa ronde, et euh, qui, voit, euh, <laughs> qui voit en fait un fantôme euh, sortir d'une tombe et le narguer. Alors le fantôme en fait euh, il lui monte son cul, euh, le fantôme il fait comme ça, euh, le fantôme il, il, il lui chante des, des chansons à l'oreille. Euh, bref, et le gardien de, de, du cimetière est impassible, il ne fait rien. Et là, le fantôme, en fait, il se dirige vers la sortie puis il commence à essayer de sortir. Et au moment où il commence à essayer de sortir, le, le gardien le chope euh, et en fait je lui donne des coups de masse sur la gueule et lui dit euh, euh, Ah, on, on s'amuse, on fait des blagues, euh, on, on danse, on chantonne, mais il est hors de question que tu sortes d'ici. Voilà, en gros la blague du, du squelette. Vous dites, mais c'est pas drôle du tout. Et en fait, parce que c'est une métaphore. Je l'ai peut-être mal raconté, hein, mais c'est grosso modo c'est ça. C'est une métaphore de l'époque communiste, où en gros, euh, en, en, en fait, c'était très euh, fermé. Hein, c'est une espèce, espèce de un peu comme la Corée du Nord aujourd'hui. Donc, euh, c'est qu'en en fait, il y avait l'illusion de la liberté au sein du pays. Oh putain. C'était triste en fait. <laughs> plus que c'est triste drôle. en fait, c'est triste, mais les Roumains en préférant en rire et puis en plus ils sont oh, sortis du communisme depuis. Mais voilà, c'est en fait, t'as l'illusion de la liberté que tu peux faire ce que tu veux. Euh, voilà, t'as le choix entre deux chaînes ennemies. Waouh, c'est génial. Euh, donc sorti du boulot, tu, tu peux soit diviser faire ce que tu veux, mais si tu critiques le régime, ce qui est un peu l'équivalent de sortir du cimetière, ou si tu essaies de sortir du pays, bah en fait on t'en empêche. Donc, euh, donc, en fait, t'es pas libre. Voilà, voilà c'est ça. et en fait, au début de la blague, t'as l'impression que c'est le, le fantôme qui a l'avantage sur le gardien qui fait son boulot, alors qu'en réalité, euh, c'est le contraire. Euh, voilà, euh, voilà. Puis même, même, même la, la métaphore, c'est aussi le gardien qui en fait fait son boulot sans réfléchir. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est typique des pays communistes, c'est que comme t'as pas euh, encore un pamphlet, on va dire anti-communiste. Euh, je veux dire sur, sur le plan du même du principe et de la philosophie économique, c'est que tu n'es pas motivé à travailler dans un régime communiste parce que que tu travailles bien ou pas, tu touches la même chose. En gros, tu, tu, tu y a pas l'argent, n'est plus de motivation. Et donc, en fait, tu fais ton boulot un peu comme un, comme un automate. Et donc, en fait, ton boulot, c'est juste empêcher qu'un fantôme y sorte. Euh, donc, donc, en fait, le fait de voir un fantôme, ça t'étonne même pas. Tu es là en mode, euh, voilà, euh, il fait n'importe quoi, il te pète au visage, tu là le fantôme me pète au visage. Ma mission n'est pas d'intervenir ah, à cet instant. Voilà, et là, le, et là le fantôme essaie de partir. Non, ma mission est qu'aucun fantôme ne sorte du cimetière. Donc je te ramène ici. Mais d'ailleurs, les fantômes existent. Bon, oh, ça n'a aucune importance. Tu vois, c'est okay. ça en fait. En fait, c'est un spleen, quoi. C'est une blague dépressive. <laughs> voilà. Vous avez compris maintenant. C'est ouais. la meilleure blague roumaine, c'est ça. C'est la meilleure, c'est. Il n'y a pas mieux, c'est. Waouh. <laughs> ça en dit long sur l'époque, ça. Ouais. Wow, ok. <laughs> euh, bonsoir Daniel, bonsoir Robin, merci pour votre travail. Endurance et bonne humeur tout au long de ce marathon. Ouais. Nous dit euh, je ne sais pas qui. C'est une fleur de lys apparemment qui nous donne 777 euros. Oh, my God. Ouais. Donc merci pour votre travail, endurance et bonne humeur tout au long de ce marathon. Je suis en retard de quelques émissions et je suis impatiente de les écouter. Une femme apparemment. Eh ben, Daniel, j'ai tenu à associer ce don au chiffre 7, qui évoque la complétude dans de nombreuses traditions mystiques et symbolise dans ton cas précis l'intégrité de ta démarche. Oui, c'est une femme. Magnifique. C'est magnifique. Qui plus est, ce montant précis sert également à souligner l'engagement sincère et altruiste qui, je le crois, t'anime. Bon. Pour être parfaitement honnête, je dois avouer que mon orgueil féminin m'a également intimé l'ordre d'injecter une dose mesurée d'oestrogène dans ce top 15 ultra-testéroné. <laughs> Mais trêve de plaisanterie, j'ai une question pour toi. Oui As-tu lu l'enracinement de Simone Veil avec un W, à ne pas confondre avec Simone Veil avec un V Ouais. Et si oui, qu'en as-tu pensé Dans cet ouvrage, malheureusement inachevé, Simone Veil donc avec un W, critique la prédominance d'une société centrée sur les droits individuels sans égard pour les responsabilités et devoirs envers autrui et la nation. Pour elle, une véritable transformation sociale nécessite de mettre l'accent sur les obligations de chacun envers les autres et la collectivité, visant ainsi à établir une société plus juste et harmonieuse. Ainsi, suivant cette logique qui constituerait un retournement intégral de paradigme, Ouais. Il n'y aurait par exemple plus lieu de parler de droits des animaux, notion ô combien farfelue et étrange, mais de la responsabilité de l'être humain en tant qu'être moral et conscient de la douleur qu'il peut infliger, de s'abstenir d'actes de cruauté et de mauvais traitements envers des êtres sensibles. Force à toi, Émilie de Londres. Oh. PS, il faut vraiment faire quelque chose pour améliorer ta prononciation de l'anglais, je suis prête à me dévouer. <laughs> D'accord. Merci, euh, merci, Émilie. Ça me touche beaucoup. C'est un don euh, vraiment important. Euh, et je suis content qu'une femme euh, me fasse un, un don de cette de teneur. Cette Alors, de cette qualité, je veux dire, euh, non, j'ai pas, pas lu cet ouvrage. Euh, en, en fait, sans, ça paraît pas extraordinaire. En fait, la thèse celle que tu me présentes, c'est simplement une, une, aller vers une société qui privilégie le bien commun au bien individuel. C'est. C'est toujours la grande question en fait, qu'est-ce qui prime, l'intérêt individuel ou l'intérêt ou le bien commun Bah, c est, c est, c est, en fait, les politiques sont, sont un balancier autour de cette question, c'est-à-dire, euh, enfin, sont en équilibre autour de cette question, c'est-à-dire que un homme ne peut pas penser qu'au bien commun, il doit aussi penser à lui et dans un contexte de survie immédiate, il va en général souvent penser à lui. Mais il est évident pour moi que nous, sommes, nous avons des devoirs envers la cité. C'est-à-dire en fait, on n'est pas seulement le produit, j'irai de notre papa, et de notre maman, c'est qu'on est le produit d'une race, on est le produit d'une nation, on est le produit d'une civilisation qui a, qui a préexisté à notre, euh, notre arrivée sur Terre et qui va nous survivre. Et donc, on a des devoirs vis-à-vis -vis de la cité. Donc, pour moi, c'est évident que, oui, je, je suis là, là où je suis d'accord, Bon, préfère parler des vieux philosophes pour parler d'aujourd'hui, c'est toujours un peu artificiel, mais je veux dire, pour moi, c'est évident que ce qui manque dans, le discours, dans les discours, de droite comme de gauche, hein, ce qui manque dans le discours politique actuel, c'est la notion du bien commun, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, les politiques ne rappellent pas assez que les gens ont des devoirs envers la cité. Voilà. Dans des situations de crise comme pendant le Covid, là, bon, bah, en gros, Macron a dit, euh, voilà, il faut tous qu'on se batte contre cette guerre qu'on mène contre le virus, etc. Mais on aimerait que, que, que ce langage-là et cet engagement-là soient mis euh, au service d'autres euh, projets euh, pour la nation. Et, et, et moi, c'est pas du tout un discours qui me choque. C'est un discours de responsabilisation. Par exemple, moi, j'estime que de, de, concernant la dénatalité, ce sont les politiques qui ne font pas bien le travail. C'est-à-dire qu'au-delà euh, du fait, euh, si tu regardes bien en fait la politique, mettons de côté l'immigration. Si, y avait, si y avait, on arrêtait l'immigration en France, en fait, la politique actuelle française, elle est nataliste en réalité. Mais ça marche pas tant que ça aussi parce que les, les, les politiques n'insistent pas sur l'importance. Voilà, moi, j'ai jamais vu un politique en français Français s'exprimer à la tribune, dire écoutez, euh, il, j je souhaiterais aussi rappeler aux, aux Français euh, leur responsabilité vis-à-vis -vis de la nation. La nation a besoin d'enfants. La, la nation et euh, la République française a besoin, puisque la République est sanctifiée en France, alors employons ce mot la République française a besoin euh, de se perpétuer. Et on se perpétue euh, à travers le temps euh, par l'enfantement. Le, Donc, euh, J'en appelle à la responsabilité des Français. Lorsque vous avez trouvé une compagne ou un compagnon, euh, il apparaît euh, indispensable, euh, pour, si vous aimez cette nation qui, qui, qui est notre mère à tous, euh, eh vous-même de, de participer eh bien, à, la, à la continuité de la vie. Enfin, voilà, C'est des discours. Pourquoi on n'entend pas ces discours Ce n'est pas, pas un discours non plus, genre, on vous force à faire des gosses, sinon, euh, sinon vous allez en taule mais ces discours de responsabilisation, ils fonctionnent, de resp responsabiliser les gens. Moi, j'ai remarqué, on va dire dans mon petit niveau euh, personnel, que quand ça touche quelque chose de juste, quand c'est quelque chose de juste que vous demandez aux gens, beaucoup sont réceptifs. Ils disent, ah oui, c'est vrai, tu as raison, euh, tu as raison, c'est vrai, je ne voyais pas les choses comme ça. Euh, voilà, c'est... Bon, tu m'as posé une question très philosophique et je t'ai donné une réponse politique, mais je pense qu'elle est pas mal. <laughs> voilà, donc merci à toi. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Euh... Camille. Camille En Finlande, il y a un nouveau gouvernement depuis le 20 juin 2023. Yes. Il s'agit d'une coalition entre la droite et l'extrême droite. Ils sont clairement orientés contre l'immigration. Une ministre a déclaré « nous ne devons pas avoir les yeux si bleus » expression finlandaise pour « naïf ». Au point que bientôt, nous n'en aurons plus. Des yeux bleus. Oh, magnifique. Mieux, la numéro 2 du gouvernement, Rika Pura, Pura, qui est ministre des Finances, subit actuellement une polémique liée à, pro à des propos qu'elle a tenus dans le passé. En 2019, elle a tweeté À votre avis, est-ce raciste de traiter un violeur africain de racaille humaine Mais ce qui l'a mis dans l'embarras, ce qu'il la met dans l'embarras, c'est un blog qu'elle a tenu en 2008. Voici quelques-uns de ses propos. Accrochez-vous bien. Elle a donc écrit. De petits points. Est-ce que quelqu'un est prêt à cracher sur des mendiants et à battre des n-words aujourd'hui à Helsinki euh, Autre citation. Je suis tellement pleine de haine et de pure rage que je suis sur le point de fondre sur ma chaise. Bon sang, Islam, qu'est-ce que tu fais à mon psychisme Ensuite. Si on me donnait une arme, il y aurait des cadavres, même dans les trains de banlieue. Je répète, c'est le numéro 2 du gouvernement actuel finlandais. Le premier ministre a dit qu'il s'en foutait de la polémique. En fait, ils vont juste enterrer la polémique avec une charte antiracisme. Mais bon, on a tous compris incroyable. Quoi. Qui l'eût cru euh, Une extrême droite, une droites droite plus virulente qui renaît comme ça euh, en, en Finlande. Mais j'en avais parlé dans un Danny un News. Enfin, euh, mais, mais les gens ne le croient pas en fait. Les gens ne, les gens ne le croient pas parce que c'est trop loin d'eux. Moi, ce que je crois, c'est pourquoi, pourquoi le milieu nationaliste français a du mal à évoluer. C'est parce qu'il est trop centré sur l'actualité franco-française. Et il ne se rend pas compte qu'il se passe d'autres choses d'ailleurs, Parfois pire, parfois décevante. Euh, clairement, voilà, ce qui s'est passé depuis l'arrivée au pouvoir de Mélanie en Italie n'est pas satisfaisant. Mais parfois, euh, voilà, franchement, euh, observez bien que j'ai été un des seuls à faire le, en tout cas un des premiers à faire le, le focus sur le Danemark en disant c'est un truc de malade les socialistes au, da au Danemark sont devenus anti immigration enfin c'est c'est juste un flip flap incroyable donc euh, les, les, les pays euh, du, du nord sont de plus en plus intéressants je ne lâche pas euh, le morceau et je continue de les suivre et, et je vais vous dire un truc très clair c'est que actuellement le Danemark, la Suède et la Finlande ont au pouvoir des partis plus identitaires, que la Roumanie ou que la, ou que la République tchèque. C'est juste que euh, la Roumanie et la République tchèque n'ont pas fait le choix de l'immigration comme les, les pays du Nord l'ont fait il y a 15-20 ans. Donc vous avez toujours moins de non-blancs en Roumanie qu'il n'y en a, euh, peut-être pas en Finlande, je ne sais pas, mais qu'en Suède, il y, a, il y a moins de non-blancs en Roumanie. Il y a moins de noirs, il y a moins de maghrébins, il y a moins d'arabes, il n'y en a pas d'ailleurs. Euh, mais, mais la politique actuelle en Roumanie n'est pas du tout identitaire. C est, c est pas, elle n'est pas non plus immigrationniste, elle est centriste. Alors que là, on a vraiment des parties de droite au pouvoir en, en Scandinavie, en Finlande, c'est très intéressant. De la part de Raphaël, tous mes encouragements et mon amitié à ce duo de choc. À quand une suite au génial et hilarant roman Gorgone Une suggestion Un épisode de nos grands génies consacré à François Champollion et son frère. C'est une épopée extraordinaire qui a fait l'objet d'un très bon documentaire Arte. C'est une bonne idée. Ouais, on est clairement, ça mérite une, une émission Nos Grands Génies. Je connais pas bien l'histoire de, de, de Champollion, mais je pourrais, euh, je pourrais la, traver, la travailler. Euh, bien sûr, parce que ces émissions me permettent aussi d'en connaître plus euh, sur ce, ce genre de personnage. Euh, une suite à Gorgone. Écoute, moi, j'ai pas un public qui aime, les, euh, qui aime la littérature de cul, mais moi, j'aime bien en écrire, j'aime bien en lire. Donc, peut-être par plaisir, je le ferai un jour quand j'aurai assez de temps. Pourquoi pas, ouais. Camille, hello. Pays-Bas, le parti de droite libéral de l'actuel Premier ministre néerlandais Mark Rutte, r u -T -E, je ne sais pas comment ça se prononce, a déclaré vendredi 18 août être prêt à gouverner aux côtés de l'extrême droite de Geert Wilders à l'issue des législatives anticipées du 22 novembre. Geert est connu pour ses propos virulents contre l'islam. Il est sous protection policière H24 depuis des années. Ouais. Il a écrit un livre, Marked for Death. Donc euh, voilà, ciblé pour, pour être mort, quoi, assassiné. Dommage qu'il n'y a pas de traduction française de ce livre, si ça te tente, Dani. Pas con, pas con. Merci. Ouais. Ouais, ouais, bah écoute, euh, ça montre que ça bouge dans beaucoup de pays et que le, le, le désespoir... Euh, C'est une phrase de Moras, qui est assez vraie. Le désespoir en politique est une, une bêtise absolue, quelque chose comme ça. Euh, je suis champion des citations approximatives, mais, mais je ne trahis pas le sens de, de cette citation, je crois pas. Euh, oui, c'est pour ça que dire euh, tout est foutu, etc. Dans plein de pays, la droite est en train d'arriver au pouvoir. Euh, il y a eu cette petite déception en Pologne où on n'est pas certain encore, mais il est possible que le Pi s'est perdu le pouvoir. Mais il y a plein d'autres pays où la droite arrive au pouvoir. Donc euh, vraiment, ça bouge beaucoup en Europe. C'est loin d'être terminé. La bataille ne fait que commencer. Et euh, on en a encore une preuve avec ce que tu nous dis des Pays-Bas, bien sûr. « Salut à vous, Daniel et Robin, nous dit Lucas. J'apprécie particulièrement ces lives qui sont une bouffée d'air frais. Est-ce qu'une émission est prévue avec le responsable du média Rage ?» Oui. « Vous avez une ligne assez similaire et je trouve que ce média est infiniment supérieur à ce qu'il se fait à droite de manière générale, même si peu accessible. Grâce à ce média, je n'ai jamais eu de problème d'éco-anxiété et il apporte des données concrètes à la ligne identitaire. Ouais, » Les articles sont bons, ces articles de fond euh, sont vraiment excellents. Euh, oui, il était question à un moment donné que je fasse une émission avec, euh, avec pas mal de membres de l'équipe. Euh, ça se fera un jour ou l'autre. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on est amis. Amis idéologiques, on n'est pas d'accord sur tout, mais franchement, sur beaucoup de choses. Donc après, c'est de l'ordre. Euh, après, je dirais que c'est de l'ordre de l'enculage de mouche. Hein. On ne va pas être d'accord sur un terme, on ne va pas être d'accord sur euh, telle priorité. mais enfin, bon. euh, Et puis en plus, le, 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 site, le site est joli, il y a une esthétique aussi. Donc le site Rage Culture, on vous invite à le, à le suivre il est très intéressant. Les articles sont vraiment passionnants. Un live en chaussettes, oui, mais on veut des chaussettes fantasy, nous dit Benjamin Pavillard. <laughs> euh, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais je vous promets de faire un effort. Euh, dé Déjà, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, observez que je fais vraiment des efforts. Hein. Franchement, quand je vois des vidéos de moi en 2016-2017, euh, j'ai honte de mon mois d'avant. Hein. Donc peut-être que dans trois ans, j'aurai honte de mon mois de maintenant. Mais euh, je vais faire des efforts euh, sur l'esthétique. Voilà. Et je vais euh, balancer ce canapé à la poubelle parce qu'il est en train de me, me créer une scoliose non, le... euh, à vie mais le aux enchères. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. <laughs> c'est vrai, mais alors le problème, c'est que la plupart des, des gens qui nous regardent sont en France. Comment je vais l'expédier en eh France bah, euh, Plus euh, le... les frais de port. Voilà. voilà, exactement. <laughs> je passe, doit coûter 100 balles, je connais. Non, mais sinon, un, c'est une bonne idée. Hein. Un expert des, des livraisons là qu'on connaît. Moi, on demandera à Alex, moi. Ouais. Euh, merde, la page. Et merde. En attendant, je lis le, le commentaire de Fred Lumo sur YouTube. Travailler, s'amuser, se reproduire. Bravo, DC. Bah, je suis d'accord. Travailler, travailler. Ça fait rire les mecs qui disent oh, mais Daniel, tu connais pas le vrai travail. <laughs> Déjà, avant, avant de faire ce que je fais là, j'ai fait des petits boulots, j'ai travaillé. Euh, et puis, je suis pas un débile. Enfin, je, je, on peut connaître les choses. On n'a pas besoin de, de faire la guerre pour connaître la guerre. On, on peut deviner certaines choses. Euh, et, et ce que je fais est évidemment un travail. Voilà, c'est pas tellement évident que je n'ai même pas envie d'argumenter là-dessus. Euh, si vous pensez que c'est facile de faire ce que je fais, mais rien ne vous empêche d'essayer. Voilà, tout simplement. Macron a dit à Le Pen lors du débat du second tour en 2022, nous dit Camille, l'UE est comme un syndic de copropriété. J'aime bien cette image. Justement, la Slovaquie est dans l'UE depuis 2004. Quelle est la position de ce petit pays vis-à-vis -vis de l'islam En 2019, la Slovaquie a interdit l'islam. Mmh. De petit point, il est désormais interdit de construire ni mosquée, ni salle de prière en Slovaquie. Si, on en avait parlé. Les célébrations de fêtes religieuses à caractère islamique sont strictement interdites. C'est bien de le rappeler. <laughs> Ce rêve bleu justement. Les mariages religieux ne sont pas aussi reconnus par la loi en un mot la pratique de l'islam est interdite en Slovaquie. Ouais. Je suis d'accord, ils ont très peu de là c'est Camille qui parle, je suis d'accord, ils ont très peu de musulmans mais la ré réalité est qu'ils l'ont fait et ils n'ont pas eu d'attentat que je sache. Ouais. Je rêve d'un jour où on ferait un référendum dans toute l'UE faut-il interdire l'islam dans toute l'Europe et que tous les pays votent. Bah, c est, c est, tu me voles ma vie là c'est ce que j'ai dit dans, dans, dans toutes les émissions que tu as vu où on a parlé d'islam dans, dans, dans ce programme je pense qu'il faut focaliser, pour moi c'est évident qu'il euh, y a une urgence euh... ah, bien sûr les gens quand je dis ça les gens te mettent toujours dans la case ouais en fait t'es un néo-conservateur, t'es juste dérangé par l'islam alors que la réalité c'est plus compliqué que ça, ben je sais connard mais sauf qu'en fait tu fais des hiérarchies de priorité et euh, en fait les musulmans ils sont beaucoup, ils font plus d'enfants que nous ils visent l'Europe, ils nous détestent, ils sont très organisés, il y en a dans tous les pays, euh, ils sont ultra-fraternels, c'est-à-dire quand il y en a un qui, qui se fait castagner, les autres veulent se venger, ils n'ont pas peur de la mort, ils nous détestent, je le répète, ils ont une religion que, qui, qui est notre, notre, notre némésis depuis qu'elle existe. Enfin, oui, il y a quand même une petite priorité à en particulier empêcher les musulmans de venir en Europe. Voilà, ça ne veut pas dire que j'adore qu'il y, qu y ait des millions d'Africains en France noirs, je veux dire. Mais, mais, mais pour moi, c'est évident que l'islam est pire. Voilà, c'est tout. Euh, mais par rapport à ce que tu as dit, euh, oui, bah sur la Slovaquie, là j'ai mis d'ailleurs un, un lien dans le chat sur, euh, effectivement, le, la construction de mosquées est interdite en, en Slovaquie. En tout cas, elle a été interdite en 2019. Je ne sais pas s'il y a eu une évolution depuis, mais il n'y a, a pas de raison. Euh, donc, oui, la preuve, c'est que quand on veut un peu, et je vais te dire autre chose, c'est que c'est vrai que moi, vraiment, je suis un pragmatique. Et par exemple, quand on parle de pays catholiques, un peu comme la Pologne, même si le catholicisme est en recul en Pologne, moi, je me demande pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui ne propose pas, dans, dans des pays de tradition catholique, cette chose-là. Et euh, c'est une, une idée que j'ai depuis longtemps. C'est qu'au moment du processus de naturalisation, la personne qui souhaite devenir un national, mettons un national polonais, le mec est arabe et en fait il a une feuille. Et sur cette feuille il y a marqué les, euh, les personnes qui... Enfin, vous souhaitez devenir un citoyen de Pologne, vous souhaitez obtenir la nationalité de la Pologne. Et un Polonais admet le cœur sincère qu'il n'y a, euh, qu a de Dieu que Jésus-Christ et honore la, la, la Sainte Vierge Marie. Euh, veuillez signer en dessous. C'est con, mais un, un musulman ne signera pas. Il y a beaucoup de. La plupart des musulmans ne signeront pas. Je, je vous fais une phrase comme ça, je suis un peu fatigué, je ferais formuler la chose mieux, mais je sous-signais Mohamed al al euh, en fait, euh, affirme que je crois en, en, en Jésus-Christ notre Seigneur. Euh, et souhaite devenir un citoyen de la Pologne, euh, de la démocratie, euh, république démocratique, vous euh, voyez ce que je veux dire, de la, de, de la Pologne. Je signe ici. Bah, beaucoup de musulmans ne signeront pas. C'est tout. Bon. C est, c est, c est, c est... Ils y croient vraiment à leur religion, hein à, la, à leur religion à la cour. Je veux dire, dire c'est sérieux. C'est sérieux. Moi, je, je, je... Alors vous allez me dire oui mais le problème c'est que t'as plein de, de gauchistes qui diront Ouais mais attends moi je suis polonais blanc et je me reconnais pas dans Jésus-Christ, ta mère la pute. Mais, mais oui, mais voilà, ces leviers dans des pays qui sont encore très conservateurs et où la religion a un poids, ben, moi je pense qu'il faut les utiliser. Il faut les utiliser, faut les utiliser mais il n'y a aucun problème. Moi même si je ne suis pas croyant, moi je signe. Hein, pour un pays où il n'y a pas de musulmans, euh, où on me garantit qu'il n'y aura jamais de musulmans euh, naturalisés, et moi je que moi le Christ sauveur, moi je fais une prière, hein, je reste à genoux pendant huit pendant heures, hein. aucun problème. Voilà, c'est une idée comme une autre. Charles Protecteur, merci. Merci, merci à toi. Craig, euh, Craig dans Malcolm, okay, nous dit, trouves-tu que Bucarest est la little Paris of the East, c'est-à-dire la petite Paris de, de l'Est Qu'est-ce que tu aimes dans cette ville Rien de particulier. Euh, J'aime bien la Roumanie parce que je trouve que c'est un des pays les plus doux d'Europe de l'Est. Les gens sont assez, euh, assez agréables en moyenne par rapport à d'autres... Si vous venez ici, vous vous trouvez antipathique, mais si vous allez dans d'autres pays de l'Est, vous allez les trouver pire. Le climat est tempéré. La langue roumaine, je l'aime bien. Elle ressemble un peu à une espèce d'italien bizarre. J'aime bien le physique des Roumaines. Je préfère en fait les, les femmes d'Europe du Sud que les femmes d'Europe du Nord. Je préfère les brunes, en fait. Euh... Mauvaise réponse. <laughs> voilà, après, euh, la ville en elle-même n'est pas jolie. En fait, on l'appelait euh, Mikul Paris, euh, Bucarest. Avant le communisme. Et tout, pratiquement tout ce qu'il y avait de beau à Bucarest a été détruit par, par, ces, par ces enculés de communistes. Et donc maintenant, euh, c'est plus du tout le petit Paris. Hein. C'est l'Argenteuil cool voilà. argenteuil. Là. Ouais, c'est ouais, mi-cool. Euh... Enfin, maroul argenteuil, même. Bah non, mais, non, mais, mais pas argenteuil au sens où il y a des immigrés, mais au sens où voilà, c'est. Non, bah non. Il y a euh, des barres d'immeubles. En fait, il y a un centre-ville historique qui se visite en 45 et minutes et après, c'est barres d'immeubles à gogo. Hein. Parlez pas des êtres donc, euh... donc voilà, après, il y a un charme, je dirais, il y a un charme destroy à Bucarest, c'est-à-dire que. Des euh, Petit à petit, ça se rénove et ça, et ça innove. Donc on a, des, on a des buildings qui sont un peu plus jolis maintenant. Donc il y a un côté un peu, oserais-je le mot, cyberpunk. Il y a un côté un peu cyberpunk. <laughs> C'est-à-dire que... Non, mais cyberpunk dans le sens où euh, la Roumanie est très évoluée au niveau de l'Internet, l'Internet va très vite, euh, les, les, tout, tout ce qui est nouveau, en fait, tous les, les, les malls, les grands centres commerciaux, en fait, sont hyper high-tech. Tu as le wi partout, ça marche super bien. Euh, tu commences à avoir des taxis électriques. Et puis à côté de ça, bah, tu as des immeubles déglingués, tu as des cafards dans la rue. quoi. Donc ouais, Cyberpunk, ça lui va très bien. Il y a une autre ville qui est un peu comme ça, qui est Belgrade. Euh, j'aime bien ces ambiances-là. Moi, j'aime moi, moi bien. Euh, en général, les femmes n'aiment pas. Voilà. Ils aiment bien que, que, que ça soit un peu plus clean. Il voilà. bah, y, euh, y, y a des parcs aussi. Il y a aussi des très super beaux parcs. Il y a des très beaux parcs, effectivement. Euh, non, c'est une ville euh, qui dans la moyenne basse de, de, des villes de l'Est. c'est pas la pire, euh, c'est pas la meilleure, loin de là. Mais s'il un équilibre sympa que j'ai trouvé. Euh, voilà s'il n'y avait, avait pas tous ces, ces livreurs pakistanais ce serait parfait trafic de merde aussi hein. pire que Paris oh non je dirais pas ça oh, euh, voilà. en journée ça peut être chiant mais la différence avec Paris c'est que tu circules très bien la nuit à Bucarest en voiture tu vois qu'il y a quand même moins de gens qui sortent qu'à Paris alors qu'à Paris tu peux te taper des bouchons nocturnes c'est quand même insupportable hein. Voilà. Ouais, pour, pour se garer c'est quoique que tout le monde se gare n'importe où ici ça va, c'est moins chiant qu'à Paris. Tu peux, en fait, euh, sur le trottoir, prendre un parc euh, pour enfants. C'est en train de changer doucement, mais effectivement, c'est euh, quand même euh, agréable. La voiture est roi et reine ici. Tu peux tu, tu peux tu peux te garer un peu n'importe où, c'est vrai. Sophie nous demande Oui. Tu as un milliard. Oui, là Qu'est-ce que tu en fais Merci de tout dépenser, sinon ce n'est pas du jeu. <laughs> Euh, oh, bah c'est très simple. Si on, on, on va simplifier la question parce que certainement que si j'avais un milliard, je ne ferais pas une seule chose, je ferais plusieurs choses. Mais si je devais faire une seule chose, c'est très simple. Pas la et, question, c'est qu'est-ce en fait, qu -ce que j'en fais J'achète le maximum de terres et d'habitations dans un même endroit. Je fais un repérage, euh, je vais à l'endroit qui me semble moins euh, dans l'œil de Sauron, euh, du, du, Sauron du mondialisme. Et, et, euh, et en fait, je privatise. Voilà. Euh, dans un pays où il est possible de le faire. Donc, pas la Thaïlande, par exemple, mais euh, dans d'autres pays. Euh, voilà. Il y a des pays, euh, notamment d'Amérique du Sud, comme le Paraguay, où tu peux privatiser, en fait, euh, des. Euh, en fait, tu peux créer ton micro-État, quoi. Tu euh, je sais pas. Tu, tu peux refaire Orania. Il y a vraiment des endroits où tu peux refaire Orania, mais il faut beaucoup d'argent. Je ne sais même pas si un milliard suffirait, mais. Voilà. Tu arrives avec un milliard en Moldavie oh tu peux acheter plusieurs villages hein. oh oui largement largement et, et, et ce faisant ayant acheté des villages c'est toi qui décides qui est-ce que tu mets dedans et donc et en fait ton, ton ethno-état qui ne dit pas son nom il existe et ça c'est mon rêve euh, parce que je suis persuadé qu'à terme en fait je suis persuadé qu'il y aura un peu d'immigration dans un peu toutes les grandes villes d'Europe ce qui est déjà le cas et que ce phénomène va s'accentuer et ça me plaît pas parce qu'en fait ce que je, je me suis rendu compte en vivant dans une capitale comme Bucarest et en en visitant plein d'autres c'est que au-delà du fait que je suis un racialiste blanc et que je trouve insupportable l'idée qu'on soit entouré d'immigrés non blancs en Europe et en parce que, enfin, surtout en Europe de l'Ouest, en fait je suis aussi en fait je, je n'aime pas non plus le cosmopolitisme. C'est-à-dire même un cosmopolitisme non dangereux dans une ville sécurisée où le nombre d'immigrés on va dire est euh, non pas résiduel. On peut pas dire que le nombre d'immigrés est résiduel en Roumanie. Il y en a quand même en juillet à Bucarest on en voit on voit vous sortez vous restez 5 heures dehors heure, vous allez en voir plein vous allez voir plein de touristes vous allez voir plein d'étudiants vous allez voir des travailleurs vous allez voir des, des des mecs un peu paumés vous allez voir quelques migrants mais, mais bien évidemment qu'il y a 95% voire plus de blancs mais malgré tout ça me fait chier en fait le cosmopolitisme le fait que le fait d'entendre anglais parler, entend, parler anglais partout ça me fait chier euh, donc euh, qu'est-ce que je disais euh, ben, voilà donc, donc très, très clairement parce que si j'avais beaucoup d'argent j'aimerais Pouvoir créer vraiment un safe space durable. Euh, mais le tout, c'est de ne pas le politiser. Il ne faut surtout pas le faire et après planter un drapeau euh, demi-nazi. Et dire Ouais, on est entre blancs, ni que vos mères. Non, tu le fais, c'est tout. C'est super, c'est génial. Les gens adorent, les gens visitent. Mais euh, c'est toi qui décides qui habite ici. Et tu peux encore le faire en Europe de l'Est, dans pas mal de pays où les villes euh, et les, les maires ont, 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 ont pas mal de pouvoir. En ont plus que les mères français, par exemple. Voilà ce que je ferais. Moi, je mets tout sur l'Ethereum. <laughs> ouais, vraiment, c'est moi Ouais, je mets tout en Dogecoin pour avoir ah, 10 ça. milliards, frère. <laughs> oh, Allez, ouais, ouais je prends 100 000 balles pour m'amuser quand même. Oh Faut pas exagérer sur un milliard. Hein. Oh, 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 oh. Et, je dirais 50 millions. T'achètes un, un studio d'enregistrement à Paris pour faire des, des TVL bis mais tu sais, mieux. Un milliard, mais j'arrête mes vidéos, t'es fou, toi. <laughs> Ça non, foutre. mais c'est pas toi qui les fais les vidéos. Tu délègues, je délègue, bien voilà, sûr. Évidemment. Euh, évidemment. Non, mais tu t'as le. Tu viens milliard... Non, mais voilà, mais pour rigoler, mais un milliard, c'est vraiment une puissance financière qui est telle que, en fait, j'aurais tellement plus d'actions sur le monde en faisant, en achetant, en investissant dans la terre, euh, en, en finançant de des projets concrets, même d'investissement. Qu'en qu faisant des vidéos, que probablement je ferai moins de vidéos. Mais par contre, je ferai des vidéos super quali. Je délèguerais absolument tout, bien sûr, évidemment. Euh, je paierais des meufs juste pour être là, pour que ça buzz. Enfin, tu vois, c'est euh, rien à foutre, quoi. Je, je... Tellement de choses à faire. Si quelqu'un a un milliard, hein, contactez-moi. Hein, je saurais quoi en faire, hein, croyez-moi. <laughs> non, mais par contre, très sérieusement, euh... si quelqu'un qui nous écoute ce soir est millionnaire ou multimillionnaire et ah, il se passé dit. Ah, ils fait une annonce. Ah, non, je n'hésite pas. Si quelqu'un a une puissance financière énorme et qu'il croit en moi et qu'il veut investir en moi, qu'il me contacte. J'ai des tas de projets et je suis prêt à travailler d'arrache-pied pour un investisseur de haute qualité. Donc, euh, je ne travestirai jamais mes idées au nom de... de, de, de euh, je veux dire, si quelqu'un vient pour me proposer de l'argent. Mais euh, bien sûr que... J'espère un jour tomber sur quelqu'un qui a cette puissance financière pour faire avancer plus vite la ligne euh, racialiste blanche, rationnelle, prométhéenne et tournée vers le futur. Alors ça, vraiment, euh, c'est un rêve, bien sûr. Ça ne m'empêchera pas, même si ça tombe jamais, de continuer à faire mon, mon, mon petit bonhomme de chemin. Mais il faut que ça soit dit. Un, un, un financement, ça va se chercher aussi. Donc, euh, on sait jamais. Tu sais, il y a des milliers de gens qui regardent mes vidéos. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui pèse euh, en patrimoine 30 millions et euh, qui a à la banque 1 ou 2 millions. Contactez-moi. Je saurai quoi en faire. Non, mais freiné 50 millions, le studio, euh, je disais au pif. Et puis, ouais. je parlais de studio euh, avec le matériel dedans et les, les employés, tout ça. Puis tu peux voir euh, sur 5 ans. je Frédéric, je suis votre homme. Bah vas-y, hein, si t'as un milliard, contacte nous. <laughs> Daniel Conversano @tuta.com. T-U-T-A. N-O-T-A. .com, t -t com. Je pense que c'est super cher un studio de de broadcasting. Bref, bref. Ouais, euh... bon, elle t'a dit 50 millions, ouais, dit 50 dit millions, pif, euh, bien sûr. Hein. Euh, Camille. Encore. Allez, he's back. Euh, ouais. En Suède, le gouvernement qui est une coalition des droites ont passé un pacte avec l'extrême droite, le Parti démocrate de Suède. Voici quelques-unes de ces citations. L'immigration de masse a transformé une Suède ethniquement homogène en un pays multiculturel marqué par la violence, la drogue et les conflits ethniques. Un pays où l'avenir s'annonce de plus en plus sombre. Bien sûr, une société multiethnique peut fonctionner, mais il faut un leader fort qui gouverne d'une main de fer. Ce que j'ai souvent et dit. Est-ce que nous voulons Est-ce que c'est ce que nous voulons, -ce que ce que nous voulons Celui qui dit qu'il est avant tout musulman et ensuite suédois n'est pas un vrai suédois. Mais excellent. Tu vois, je connaissais pas cette citation et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit. Euh, D'ailleurs, en fait, je l'ai dit chez Livre Noir c'est que le seul moyen de faire fonctionner une cité ou un pays multiculturel, c'est un pouvoir extrêmement fort. Euh, alors, c'est mieux que rien. Tu vois, enfin, c'est ce que je souhaiterais pour la France actuelle. Vu le nombre de nationaux qui ne sont pas des blancs et qui donc se comportent mal, mais qu'on ne peut pas virer parce qu'il ouais, faudrait virer sur une base raciale et c'est compliqué. Euh, en fait, moi, je prône une société ultra sécuritaire en France, le temps de calmer tous ces saloperies. Voilà. Donc, euh, un peu comme euh, Singapour est, un, est une ville. Euh, pour un État libéral sécuritaire, en fait, quoi. une ville-État, euh, enfin, une ville, une ville qui sait se protéger. Mais dans l'idéal, évidemment, c'est ce que dit euh, Renaud euh, Camus, on veut pas le... En fait, on veut pas sécuriser l'enfer, on veut la liberté, on veut la civilisation, je suis parfaitement d'accord. Mais, mais, mais le, le, la Scandinavie peut se le permettre parce qu'ils ont, ils ont essayé l'immigration quelque temps, mais pas suffisamment longtemps, et tant mieux pour eux, pour que ça, ça soit, euh, je dirais, un danger. Euh, pour, pour la suite euh, pour, pour leur avenir mais c'est génial hein, vous et, et ça regardez regardez observez quelque chose moi aussi je vous ai parlé de la Suède j'étais très content quand la droite est passée en Suède je m'intéresse à ce qui se passe ailleurs en Europe mais est-ce que la droite française vous en a beaucoup parlé ça j'ai vu que Rieux et quelques identitaires en parlaient les, les, les souverainistes vous en parlent jamais de ça ils vous disent jamais que tout en étant euh, je veux dire tout en étant autant friendly euh, la Suède la Finlande ont juste mis au pouvoir des mecs ultra vénères et en fait, selon nos critères français, d'extrême droite. Il peut pas être plus clair que ça. En fait, en gros, qu'est-ce qu'il dit le mec là dans ce que nous a cité Camille C'est euh, on a essayé le multiculturalisme, ça marche pas. Euh, il faut qu'on se préserve ethniquement. Il y a deux doigts de parler de gêne et de race, quoi. Donc c'est fabuleux. Euh, et, et évidemment, nos, nos regards sont portés sur ces pays qui euh, qui ont sont pour nous une, un exemple, voilà, à suivre. Danemark, Suède, Finlande. C'est très intéressant ce qui se passe. Pour l'instant, ça contamine pas positivement la, la Norvège, mais sait-on jamais euh, voilà. Camille, encore Again. et toujours, il y a actuellement 27 pays membres dans l'UE. Yes. Les pays se divisent en deux catégories. Ceux qui sont contributeurs au budget de l'UE et ceux qui sont bénéficiaires des subventions. Sur les 27 pays, il y a seulement 8 contributeurs la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède. Tous ces pays, sauf la France et l'Allemagne, Oh oui. Vire tous à droite selon nos critères sur l'immigration, surtout l'Autriche, la, fi la Finlande et l'Italie. Euh, en réalité, le pays clé pour que tout change en Europe, c'est la France, deuxième contributeur du budget derrière l'Allemagne. Si notre pays vire à droite, tout changera en Europe, car les pays contributeurs actuels ne pèsent pas assez en Europe, d'un point de vue de la puissance. Donc, je dis à tout le monde. Voter en masse aux élections européennes Très pour juste. le parti anti-immigration, celui du RN, en tête des sondages. Malheureusement, le parti reconquête est trop loin et serait une voie perdue. Enfin, je, je tiens à préciser que le pays numéro 1 en termes de subventions reçues, c'est la Pologne. Avec le principe bien connu, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. La Pologne pourrait virer à gauche, selon nos critères, malgré un discours officiel contraire. La Hongrie aussi reçoit énormément de subventions. Donc, que penser des discours anti-immigrés de ces deux pays alors qu'ils sont sous perfusion de l'UE Idéalement, il faudrait qu'ils deviennent ah, okay. contributeurs pour peser dans le syndic de copropriété UE. Merci. Ok, euh, très intéressant, mais super long. Voilà, modérez vos longueurs. Je suis d'accord, mais parce que c'est quelque chose que j'ai dit. <laughs> T'en rends pas compte, mais c'est des choses que tu dis, des choses que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que euh, si... L'Allemagne ou la France bascule à droite, l'Europe bascule à droite. Parce qu'il y a énormément de pays qui ont, 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 ont mis au pouvoir des personnes qui ont, euh, mènent une politique, même si elle ne dit pas, son, se ne présente pas comme identitaire, est identitaire, factuellement. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais, euh, mais mais, mais c'est pas une mince affaire, parce qu'on est encore loin du pouvoir. Euh, voilà, Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut voter aux européennes. Parce qu'on a, on a la chance de pouvoir une, avoir une majorité de partis qui pensent bien et qui pourraient déboulonner, on va dire, le Bruxelles de gauche. C'est l'idée de s'emparer, en gros, de, de, de Bruxelles. Euh, et, et ça changerait énormément de choses, je suis d'accord avec toi. Je sais tout ce que tu as dit, effectivement. Euh, maintenant, faut modérer. Ce voilà. c'est pas, pas parce que tu touches des financements que tu vas accepter les changements que te demande Bruxelles. Ce n'est pas, pas, pas nécessairement le cas. Voilà. On arrive aux 6 heures, hein, mais on va aller au bout des questions. Alors je vous propose maintenant de ne de, de plus poser de questions parce que sinon on ne va pas s'en sortir. <laughs> Merci à tous ceux qui ont contribué, on va, on va y aller, on va, faire le, on va faire le boulot. Petite pensée, nous dit Camille. Ouais. On dit souvent à droite que les immigrés viennent pour les prestations sociales et que c'est la pompe aspirante principale de l'immigration. En réalité, c'était peut-être vrai avant, mais aujourd'hui est-ce encore le cas Je m'explique. Un Marocain, lorsqu'il veut émigrer, pense d'abord à la France plutôt qu'au Portugal. Malgré la proximité géographique, il faut savoir que les Marocains parlent pratiquement tous français à cause du passé colonial du pays, notamment au nord du pays. Le français est enseigné à l'école et est particulièrement utilisé dans les postes universitaires au Maroc. Donc, en vrai, les Marocains choisissent la France plutôt que le Portugal. Par exemple, parce qu'ils connaissent d'autres Marocains déjà présents sur place, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut appliquer cette logique avec la plupart des pays africains. Dit autrement, la merde attire la merde. OK. OK. <laughs> oui. Ça, Camille. C'est pas un exposé bordel, c'est une question. C'est intéressant, mais enfin, c'est beaucoup trop long, merde. <laughs> mais oui, OK, OK, d'accord. <laughs> Ça c'est un vrai problème, c'est que le français s'est diffusé dans toute l'Afrique et maintenant par facilité, il y a beaucoup d'Africains qui veulent aller en France et puis pas que pour ça aussi, hein, pour euh, toutes les facilités administratives qu'ils ont en France, les aides sociales et compagnie. Nick Steyer. Yeah. Bonsoir Daniel, bonsoir Robin. Je voulais réagir par rapport à tes propos sur les États-Unis. Je m'y suis installé depuis pratiquement quatre ans entre Philadelphie et New York. Je te rejoins. Sur le fait qu'il domine, notamment économiquement, ce qui m'a d'ailleurs attiré ici. Financièrement, on s'y retrouve, bien entendu. Mais depuis début 2023, j'envisage de partir. Un sentiment de nostalgie de l'Europe me submerge. Selon moi, ce pays concentre le meilleur de tout, mais aussi le pire de tout. Effectivement, la chose positive que je retiens de ce pays, c'est une nature diversifiée et magnifique, mais ses endroits, y règnent un ennui et une absence de vie incommensurables. La vie est en, est en ville quant à elle, pardon. La vie est en ville quant à elle. Non, la vie en ville, quant à elle, est exécrable et extrêmement dangereuse. J'ai plusieurs fois été pris à partie par des non-blancs, des crackheads, et même agressé physiquement. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant avec la politique que Biden mène. Ce pays s'africanise à vitesse grand V. Je pense que nos nombreuses de nombreuses personnes idéalisent les US et par certains aspects c'est parfaitement justifié. Mais les points négatifs sont tellement nombreux, bien pensant puissance 1000, gens fake, bouffe dégueulasse, des femmes féministes et déglinguées, un coup de la vie exorbitant, euh, aucun, aucunement justifié, blablabla, bla, 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 etc. Ce n'est que mon point de vue, évidemment. Si vous avez la possibilité de venir ici temporairement pour faire de l'argent, faites-le. Ce sera également l'occasion de voir les choses par vous-même. Bonne soirée à vous tous. Un point de vue intéressant, euh, je... Je, je suis d'accord. Je suis d'accord avec. Euh, en tout cas, je suis d'accord. J'entends ce que tu dis et c'est des très bons arguments. Je ne suis jamais allé aux États-Unis. Donc, euh, peut-être que. En fait, moi, je ne dis pas qu'il est agréable de vivre aux États-Unis. Je dis que les États-Unis lead euh, tout simplement le monde et qu'il faut prendre ça en compte et que euh, c'est une autre Europe qui a quand même ses particularités. Et euh, je comprends hein, les arguments que tu donnes. Après, est-ce que tu vis peut-être dans un coin des États-Unis où il y a particulièrement d'immigration Est-ce que c'est. Il y a particulièrement beaucoup de Noirs. Est-ce que c'est le cas dans toutes les villes américaines euh, voilà, si tu pars, tu as sans doute tes raisons. Mais ce qui est clair, c'est que tu n'es pas le premier à me parler de la nostalgie de l'Europe. C'est pour ça que autant j'ai pas eu de, 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 de je, je me suis pas dit, je me suis pas posé la question Milan, est-ce que tu vas quitter la France Autant quitter l'Europe symboliquement et me chier. Je pense qu'il y a une unité culturelle en Europe qu'on ne retrouve pas exactement dans d'autres pays de peuplement européen qui ne sont pas en Europe. Euh, voilà par exemple moi j'aime les vieux centres-villes euh, européens, bah ben, ça me ferait chier de plus les voir tu vois, des choses comme ça euh, et, et effectivement le coût de la vie en, en aux états unis est, est, est diabolique euh, donc euh, vraiment à part euh, sauf à gagner je sais pas j'en sais rien peut-être plus de 10 000, euro, 10 000 dollars par mois je vois pas comment on peut avoir une vie avec 2-3 euh, enfants je, 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 je comprends pas voilà c'est vraiment un pays où il faut être dans la win hein, sinon t'es niqué Bonjour Daniel, bonjour Robin. Que penses-tu des écrits de la philosophie de Sénèque Paul. Je connais très peu. Je préfère ne pas répondre à la question, au risque de dire une bêtise. Très peu de souvenirs. Étudié en philo, mais c'est très lointain. Voici ma contribution pour cette dernière émission que je regarderai en différé. Nous dit Bud. Félicitations à vous deux pour votre travail et pour ce marathon de direct. Merci beaucoup. Et pour Votre courage. Eh ben disons, on a énormément de questions. Cette FAQ, ça fait plaisir. Pas arriver. <laughs> Euh... Bon, 87... Personne n'a dit que la Russie était mieux dans le chat. C'est quelqu'un qui a vécu aux États-Unis et qui dit qu'il veut rentrer en Europe, c'est tout. Non, il dit euh, donc la Russie est mieux. C'est sa conclusion. Ah, mais c'est lui qui c est le même, la même personne D'accord. Ah, J'ai pas compris euh... ça. Mais il va aller vivre en Russie Non, dans le chat, tu dis ah, euh, personne okay. n'a dit que. Si, si. Bref. <laughs> Euh, alors, quelques citations sympas du médecin français Alexis Carrel, okay. il dit Camille, <laughs> qui a reçu un prix Nobel en 1912. Le plus grand malheur que la civilisation scientifique a apporté aux hommes est l'oisiveté. Souvent, ceux qui sont capables de réfléchir deviennent malheureux. L'intelligence est presque inutile à celui qui ne possède qu'elle. Le faible d'esprit et l'homme de génie ne doivent pas être égaux devant la loi. Le sens moral est plus important que l'intelligence. Quand il disparaît d'une nation, toute la structure sociale commence à s'ébranler. Voilà, ça c'était des citations d'Alexis Carel, mmh. prix Nobel en 1912. Tout cela est vrai, mais euh, je vois pas comment tu peux le changer par des lois. Donc euh, ils confondent en fait toujours l'idée que le, le, voilà vouloir plus de philosophie dans la cité et, et attendre ça de l'État et en fait ça ne marche jamais. Voilà. Hugo nous demande quelle est la finition, pardon, la, défi, la signification, waouh, du Zouk en introduction des anciennes vidéos de Daniel. Euh, à l'époque, j'étais national-socialiste et en fait, Zouk voulait dire Zig sans le dire. <laughs> voilà, simplement. Le secret est lâché. Euh, Ludo, pour se faire l'avocat du diable et en objectant la décroissance libérale ou libérale illibéral ou libéral, n'est-il pas un combat sémantique quand on se dit identitaire et pro-occidental ou au moins pro-Europe La technologie n'en serait-elle pas au, niveau, au même niveau si Hitler avait battu Staline Le Japon aurait dominé l'Asie et probablement appliqué ses développements technologiques et économiques. Même. Et la question piège, ne serions-nous pas plus avancés justement, Europe et Asie unies, les, les peuples ingénieux c'est de la branlette, effectivement, mais y réfléchir, c'est aussi remettre en question les instabilités actuelles et tes certitudes entre, en majuscule, Daniel, que je soutiens par ailleurs. Euh, alors, merci pour ton commentaire, mais je dirais la même réponse en, en substance qu'à Lucas C. Rêve de faf. Et d'ailleurs, en fait, euh, c'est ce doute que tu veux insinuer en moi, j'en reviens. Donc, en fait, c'est une question que j'ai déjà résolue en moi. Euh, il se trouve que ce monde-là n'a pas gagné. Et parce qu'il n'a pas gagné, on peut pas se dire ce qu'il aurait fait s'il avait gagné. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est l'autre côté qui a gagné, tu vois euh, Voilà, c'est les, les, les ingénieurs qui ont permis, il y a les physiciens qui ont permis aux États-Unis d'avoir la bombe avant tout le monde. Bah, ils sont beaucoup d'ailleurs sont partis d'Allemagne pour aller aux États-Unis. Bah, voilà, pourquoi ils ont fui ce monde-là pour aller dans l'autre Bah, tu as la réponse est dans la question. Parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, les gens ne veulent pas de la dictature. Et la dictature perdra toujours contre. La, la dictature peut gagner momentanément, mais la, la liberté est, est un concept qui est, qui est plus séduisant. Les gens veulent se battre pour, les, pour peuvent se battre pour la liberté, mais ils n'aiment pas se battre pour la dictature. Donc c'est euh, tu vois, c'est rêve de faf. C'est-à-dire en fait, en gros, bah si euh, euh, Hitler aurait gagné, on serait allé dans l'espace, mais il ne t'échappera pas que ça n'est pas arrivé. Euh, et que tout le, le, enfin, toute la puissance militaire dont disposait, et toute la puissance technologique dont disposait euh, Adolf Hitler, il l'a mis au service de la destruction. Il euh, de n'a pas mis au service de la domination. Il n'a pas mis au service de grands projets pour l'humanité. Donc voilà, c'est tout. Euh, dans les faits, le national-socialisme n'a pas été un bienfaiteur pour l'humanité. C'est tout, c'est vrai. Quel est ton avis sur Benoît Poulvord « Et quel acteur du style es-tu sensible ?» demande Rodolphe. Euh, la, la deuxième partie de la question, je, je, je pense à autre chose, je n'ai pas entendu. « Et quel acteur du style es-tu sensible ?»« À quel acteur du style ?» Je trouve, je trouve Benoît Pleuvoir sympathique comme, comme personnage, comme être humain même. Euh, D'ailleurs, c'est un dépressif, hein, Benoît bon il l'a dit, ça se voit. Euh, en tant qu'acteur, franchement assez surestimé. Euh, il lui est arrivé qu'il me fasse rire, mais enfin, je trouve que son côté d'édlingue est assez répétitif. Euh, je n'aime pas, justement, les acteurs dans le style de pouvoir. Déjà, c'est un mec qui est pas beau. Et en fait, il est désagréable à regarder. Et donc, euh, déjà, moi, quand il y a un film de pouvoir, juste, juste parce qu'il y a sa sale gueule, je n'ai pas envie de regarder. Donc, euh, non, mais je suis désolé, hein. je suis comme ça. Hein. Moi, c'est ce euh, côté un peu pouilleux, ce pif qui fait 3 km. Euh, je n'aime pas les acteurs comme ça. Je, voilà, je n'aime pas ça. quoi. C'est dur, mais c'est vrai. Oh, On avait oublié euh, un énorme pavé d'hier. Okay. Enfin euh, énorme, ça va, ça va. Question à garder pour la fac, s'il vous plaît, de Sylvain euh, Remise. Donc bonjour Daniel, tu dis dans ton dernier live sur Kajinski préférer la ville à la campagne avec un léger mépris pour les ruraux. <laughs> discours assez ordinaire des citadins. En ce qui me concerne, je vis avec ma famille, une femme et deux enfants. Dans un village gardois préservé de moins de 2000 habitants et dans une maison avec un jardin et piscine et malgré les villes sclérosées aux alentours, je me sens en sécurité autour de chez moi. Voici quelques questions en lien avec ce sujet. As-tu essayé de vivre en France dans un petit village avant de choisir l'expatriation Serais-tu enclin à proposer un exode urbain à ton public en deuxième choix après l'expatriation Je le fais déjà. Si oui, pourrais-tu mettre en valeur, dans un prochain live, les bienfaits de la vie à la campagne, moins d'immigrés, coûts de la vie, tranquillité d'esprit, etc. Merci pour tes réponses, et qu'elle qu soit, je te félicite pour ce que tu réalises. Euh, Robin, tu peux lire mon nom et mon prénom, c'est fait. Sylvain, remise. Bah on, on la fait souvent d'ailleurs. Euh, merci pour tes nombreux dons. Euh, je pense que c'est pas à moi de mettre en avant la campagne ou alors éventuellement mettre en avant quelqu'un qui y habite ça ça peut être sympa Et parce que moi je ne peux pas être porteur de ce message non en fait moi j'aime la vie en ville ce, ce n'est pas que je pense pas avoir du mépris pour les gens qui vivent à la campagne c'est juste que c'est pas mon truc euh, voilà j'aime l'activité des vies en ville j'aime euh, en fait je suis un urbain voilà euh, enfin je suis un citadin euh, c'est tout ça va pas plus loin que ça mais, euh, mais je dis déjà aux gens qui ne veulent pas s'expatrier x raisons euh, de plutôt viser les petites villes et les villes de campagne parce que vivre entouré de blanc est le la priorité donc, euh, donc oui oui c'est après tu sais ce que j'ai essayé par exemple ma la tante de ma femme habite à la campagne on va les rendre visite souvent à chaque fois que j'y vais je me dis je détesterais habiter là c'est pas c'est une sensation hein, tu sais il y a des gens qui les campagnards qui aiment vivre à la campagne ils vont en ville eux ils ont ce même rejet vis-à-vis -vis de la ville moi j'ai un rejet vis-à-vis -vis de la campagne je me sens pas bien à la campagne euh, je, je n'ai pas cette bouffée d'air frais qu'ont les gens du tout. Euh, euh, moi, ça m'angoisse, ça en fait. Voilà. Ça t'angoisse Oui, enfin, exagérons rien, mais je peux vivre quelques temps là-bas, mais je veux dire, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie de vivre dans un village. Une, les petites villes, j'aime bien les petites villes moyennes, mais je, je ne veux pas vivre dans un village. Rebonsoir, droit au but. Quel est ton boss préféré de tout Zelda confondu Quel Entre parenthèses, justifiez votre réponse. Euh, Dark Link dans Zelda 2 sur NES. Pourquoi justifier ça Bah parce que j'aimais bien l'idée de me battre contre mon double maléfique et euh, il était très, ce jeu est très difficile d'ailleurs. Euh, et j'ai eu beaucoup de mal à le battre. Je sais que je comprenais qu'il y a un type, il y a un pattern en fait à comprendre. Fallait se mettre, faut se coller à la gauche de l'écran, faut attendre qu'il vienne, et lui tirer un peu dans les jambes, euh, enfin des coups d'épée. Mais j'avais pas compris ça quand j'étais jeune et j'ai passé une éternité. Mais du coup, c'est devenu pour moi le boss quoi, le boss le plus très 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 dur à battre. Le surboss. Le surboss, voilà. Euh, Et non pas le sous-boss. Après, bon, il y en a plein dans les Zelda 3D aussi, mais euh, tu m'as demandé d'en choisir un, donc, euh, donc voilà. Euh, bonsoir, Dani. Euh, attends. Si, c'est ça. Bonsoir, Dani, merci pour ton boulot fantastique, nous dit Joël. Pour démonter les cuistres, notamment Rojdi. Je le suivais beaucoup quand j'étais au FN RN, mais en fait, je l'ai déjà lu ça hier. Tu m'as, tu me l'as envoyé en drop, mais ça, je me rappelle, je l'ai lu. Ah pardon, ok. Peut-être qu'il me posait une question à moi, donc je verrai ça plus tard. Peut-être que oui. Attends, tu ne l'as pas répondu, je pense. Un truc comme ça. Ouais, ça va être ça. Ah oui, non, c'est un truc que tu as mis pour toi-même, en fait. Okay. Okay, okay. ok, je vois, je vois, je vois. Euh, nous continuons tranquillement notre petit chemin sur les dons. Merci à Florent... Florian J. Merci. Euh... Ta -ta Monsieur Vive l'Ukraine nous écrit en nous disant euh, ⁇ Salut Daniel et Robin, merci pour cette série exceptionnelle avec vous. J'apprends en permanence et je ris souvent. C'est mon premier don, mieux vaut tard que jamais. ⁇ Daniel, connais-tu personnellement des spécialistes des différences de QI entre les peuples J'ai rencontré Richard Lynn et certains de ses collègues. Les chercheurs de sa trempe sont de plus en plus rares. Le climat politique aux États-Unis et en Europe de l'Ouest fait que les chercheurs qui savent et disent ce qui est vrai sont exclus de la vie académique, tandis que beaucoup d'autres savent mais gardent le silence. Ils vivent dans la peur. Faire carrière en Europe de l'Est, est-ce un bon plan pour un jeune chercheur je n'en ai aucune idée, cest -à, à toi de t'enseigner pour savoir s'il si, euh, y a de l'avenir pour toi en tant que chercheur en Europe de l'Est, ça dépend des salaires, ça dépend des postes vacants, ça dépend de tas de choses. Euh, maintenant sur les, les auteurs qui euh, parlent de génétique, enfin, ce ne sont pas forcément des auteurs nationalistes, mais bon, Richard Dawkins est très intéressant à lire, euh, tu as Edward Otton également. Euh, voilà puis tu as pas mal de livres sur le QI qui, euh, qui sont sortis en français et en anglais c'est essentiellement ça que tu dois viser bah Richard Lynn je vais l'éditer en fait là euh, de manière posthume mais sa, sa biographie euh, j'en ai acquis les droits il y a quelques temps et donc euh, et donc voilà c'est Richard Lynn c'est le l'inventeur, en tout cas celui qui a mis en avant la, la carte des mondiale. Donc, euh, ça va être un, une, un événement également. Donc, Mais je pense que tu as déjà de, des bonnes bases. Hein. Mais voilà, je ne sais pas du tout, je ne sais pas que je me défausse, c'est que, tu vois, je, je, moi, je suis pas dans le milieu universitaire euh, roumain ou, 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 ou praguois ou, voilà, ou de, de, de Budapest. Je ne peux pas te dire si c'est intéressant pour toi. C'est à toi de te renseigner. Et aujourd'hui, vraiment, avec euh, Google, tu trouveras toutes les informations que tu, que tu désires. Négatif. Petit commentaire pour Robin qui a mentionné son parcours dans le doublage. Je bosse également comme. Il euh, n'y a pas écrit, comme dans ce domaine. Et j'ai certainement dû fréquenter les mêmes comédiens connus. A savoir que j'ai la sensation que les. <laughs> Je me couche. Pas. Le mec se couche. <laughs> À savoir que j'ai la sensation que les techniciens sont assez respectés dans ce domaine par rapport à d'autres secteurs de l'audiovisuel. Je suis régulièrement invité à table. Eh bien, tu as de la chance. Je, re je rencontre assez peu de comédiens purement gauchistes. Il y en a bien sûr, mais de plus en plus expriment certaines positions, notamment pendant les émeutes Naël, que l'on serait étonné d'entendre dans ce milieu. Mais évidemment, jamais jusqu'à soutenir directement la droite. Peut-être pour ne pas se faire griller ou par blocage mental. En tout cas, je peux dire que certaines idées avancent lentement dans ces milieux, Ouais, bah très lentement. Hein. Ah oui, et Whoopi Goldberg est moins sympa aujourd'hui, mais je n'en dirai pas plus. Ah bah si, il faut en dire plus là. Bah oui, ah. c'est en fait c'est comme raconter le quart d'une blague quoi. Ouais. Voilà. Comme une blague roumaine. Savez-vous en fait. si Ah ouais, voilà et qui. Et, euh, et, et soudain. Ouais, c'est c'est même pas, c'est un. C'est un dixième de branlette, quoi. Elle <laughs> te, te prend la gueule. Voilà, hop. Allez, salut. Allez. Wow, c'est voilà. chaud, quoi. Voilà. <laughs> J'allais faire une comparaison de ce style. Je vois que on a les mêmes références. Ouais. Euh... Moustaquish. Allez. Allez. Je vais m'allonger aussi. <laughs> on est bien là. On, on est bien. pourrait continuer 12 heures. On pourrait continuer hein, 12 heures, hein. bien sûr, bien ouais. sûr. Tant qu'il y a des dons, on continue. Non, ce là, que... c'est un épuisement physique euh, qui est très profond. Là. <laughs> mais allez, je, on va au bout. T'avais dit 6 heures là. Ouais, ben bah là, ça, on les a dépassés. Hein. Ah, bah oui. Les gens ne nous ont rien épargné. T'avais dit 6 heures, minimum, plus, évidemment. Plus les, plus les questions sont longues. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. Go, go, go. Ouh. Oustaki, je, ne suis euh... je me suis planté, mais je laisse comme ça. Je ne sais pas de quoi il parle. Daniel, si ton canapé essaye de te violer, c'est peut-être parce que ça commence à faire un sacré bout de temps que tu frottes ton cul sur son organe. Pas faux. Tu n'es pas une coquine espagnole, non d'une pipe. Sud-américaine, pas espagnole, attention. Les espagnols sont chauds aussi. Hein. Ah Les espagnols sont chauds aussi. Plus que les italiennes, même. Les italiennes sont là. Ah, tu m'as ah. pas marié alors. Euh. C'est pour ça qu'il y est, papa, Ah, ouais, non, ouais, ouais. Oh wait, ah bah non, oh, oh wait, wait. Oh wait. <laughs> en fait, lui, il veut des, il veut des, 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 des noirs es, euh, assimilés euh... en Espagne, tu vois. Des patriotes mmh. que les racialistes, hein, bon. Alors qu'une bonne Espagnole d'origine africaine. Pourquoi quoi, tu dis qu qu'on dit branlette espagnole, putain Putain, avec. Parce avec... que c'est son eh, mais elle casse des noix avec sa chatte. Exactement. C'est pas. <laughs> c'est une petite <laughs> merde de racialistes <laughs> qui sont pas foutus euh, de se battre à main nue contre 15 Arabes qui ont des couteaux, quoi. Voilà, la paella, elle les font avec les pieds, Et les ben, mains. Ouais, bien sûr. Et Nietzsche, je l'incule Tiens, Rogi, tu veux pas venir dans mon émission <laughs> « On t'a quand même mal parlé de Nietzsche. »« Oh, je dis !»« Tu es ma bite. »« J'ai plus de vue que toi. »« Bon, ben d'accord, je viens alors. »« C'est vrai, Nietzsche, hein ?»« Fatality. <laughs> »« Euh, ok, je vois que ça se lâche. »« Négatif, je viens de te lire. »« C'est moi qui vois double. »« Et oh, c'est pas fini, nous dit J Jérémy V. » J'ai un remède contre le Covid pour Roger. Boire du pulco. Car lorsque la bouteille est vide, t'as plus le Covid. <laughs> Attends, j'ai rien compris. Roger, Roger. You... Merde, j'ai, c'est en fait c'est une vieille vanne qu'on nous avait déjà faite. En fait, tu bois du pulco. Regarde les si j'achète le micro. Ouais. ouais. <laughs> c'est ce fait exprès, c'est fait, express, fait Ouais, c'est euh, stylé quoi. En fait, faut que le bras il soit comme ça. Ouais, enfin, pas soit un... Merci Alex hein, euh, d'avoir pété le bras de mon micro. <laughs> Allez, je m'en remets droit. C'est reparti. Euh... Ouais, donc euh, voilà. La blague, non, la blague est foirée, les gars, putain. J'ai rien compris à la blague moi. Mais quand tu bois une bouteille de Pulco. Ouais. <laughs> et qu'elle est vide. Ouais. T'as plus le Covid Il a plus le... Oh là là. C'est nul, <laughs> non, 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 je, suis qui nul je suis sûr qu'il nous l'a déjà fait. C'est nul Je suis sûr qu'il nous l'a déjà fait il y a genre 3 euh, ans. C'est une vame de merde, nous dit Nem au pangolin. Ouais. Et sinon, as-tu lu Tolkien Le mec a inventé une cinquantaine de langues, ouais. normal, un vrai génie comme tu dois les aimer. Alors oui, mais alors euh, au risque de vous décevoir, en fait, j'aime pas la l'Heroic Fantasy, ça m'a toujours fait chier. Euh, ouais, un crime oh. de légèreté, mais je, je reconnais euh, tout le respect. Hein. Non, mais je reconnais le, le génie, la création d'un langage. Euh, J'ai survolé euh, l'œuvre. Euh, très bien écrite. Enfin, euh, voilà. Invitation au voyage euh, mental. Mais euh, c'est pas trop ma cam. Voilà, c'est pas trop ma cam. Entre nous, Daniel. Oui, quoi. Juste entre nous. Oui. Le film, Le Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est un nanar Ah oh, non, je suis pas d'accord. Je dirais pas dit que c'est un anard. Mais. Euh... C'est un film qui doit sa puissance épique et essentiellement à son histoire, voilà. Mais, mais, euh, mais je, je trouve pas que ce soit un chef-d'œuvre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est un chef-d'œuvre et tout. Euh, je pense que les gens adorent l'histoire du cinéma des Anneaux, cette lutte du bien contre le mal. Mais objectivement, Zelda c'est mieux. <laughs> ouais, non vraiment. Je, je, je... Mais, mais en fait, on dit ça. Mais, mais euh, aujourd'hui, on serait ravi que le Seigneur des Anneaux sorte au cinéma maintenant. Il y a tellement de merde qui sort ouais, aujourd'hui. Ah moi j'ai euh... bien aimé. Euh... Pff, je vais me faire clasher. Quoi J'ai bien aimé la suite justement le, le, les. Le hobbit Ouais. Ah ouais d'accord. J'ai pas vu. Euh... Bah, tout le monde m'a dit que c'était nul. C'est la ouais, je sais, Tout le monde, monde dit que, que c'est nul. Cool. Mais, euh, mais en fait j'ai trouvé que c'était de la même qualité que les premiers quoi. Ouais. Faudrait que quelqu'un m'explique en quoi c'est légendaire les premiers. Et là d'accord je crois que je serais d'accord mais. Je vais pas me faire des amis. Euh, Buenas comment est estás? Nous, nous euh, nous muy coder. bien, muy bien. T'aimes-tu ça la falafelonne <laughs> <laughs> Je connais que les trucs de cul. En euh, fait, c'était censé être de l'italien, mais tu, tu sais comment euh, bah, je muy le prononce. Mouille bien, muy bien. C'est pas du, c'est pas du. Euh... Comment style Comment style Bah, mais alors, alors, alors toi, c'est pas la première fois que tu me le fais. Il, a, il a écrit Como et D'accord. Ma ok, mais tu l'as prononcé. Ouais, d'accord. Mais moi, j'ai cru que tu me parlais en espagnol. Bah, je sais. En moi, italien, je parle comme style. En italien, c'est comme style. Bene, on en Et tout. Oh putain, le chat est en feu après ce que je viens de dire. Désolé, désolé, j'adore. Oh ben, euh, j'adore Le Seigneur des Anneaux. Euh... Euh, Loubland dit c'est pas la suite, c'est une préquelle. Oui, c'est vrai. Non, mais euh, voilà. C'est comme quand on parle de la suite de Star Wars euh, qui est. Euh... Qui est en fait l'avant, euh, quoi. Ouais, l'avant de l'opposé de la préquelle. l'après, ouais. etc. Donc, Daniel, parmi tous les pays d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire oui. les pays sans passé communiste, quels sont les pays vraiment très mal barrés et ceux qui peuvent encore s'en sortir C'est une question un peu large, mais qui me semble importante. Merci pour ton travail, camarade, et salut également à Robin. Qui, qui peut savoir quels pays peuvent vraiment s'en sortir, mais les, les pays les plus atteints en termes d'immigration, euh, c'est la France, la Belgique, euh, l'Angleterre et je trouve quand même l'Allemagne. Hein. Euh, et la partie francophone de la Suisse, c'est vraiment le pire. Après, juste derrière, t'as as, l'Italie du Nord. Euh, et après, le reste est quand même beaucoup plus supportable. Voilà, euh, j'essaie de réfléchir. Ah, c'est pas terrible. Hein. La Hollande, c'est pas terrible. Hein. Les Pays-Bas, c'est pas terrible. Le reste, franchement, quand t'as fait la France, tout te paraît mieux. Hein. Mais c'est clairement en France qu'il y en a le pire. Et c'est en France qu'il y a plus de métis. C'est là, là où je trouve ça. Je trouve la situation, elle est vraiment mal embarquée en France. C'est qu'est-ce qu qu que tu fais quand il y a, euh, j'en sais rien, hein, faudrait connaître les stats, mais qu'est-ce qu que tu fais quand il y a 2 millions de métis, tu vois euh... Il y a énormément de métis en France, énormément. Enzo. Hey, Enzo. C'est non. « Ouh, je t'ai doxé, mon pauvre. Ben, allez, je vais juste dire à Enzo. Bonsoir, Daniel. Ah, Enzo, Bonsoir, Robin. Il qui Enzo. Ouais, mais il, il avait mis son pseudo. Ah, ouais, bon. Euh, petit don. Troisième contribution depuis le début de cette soirée. Je voudrais célébrer la beauté européenne. Mm -hmm. Ayant été mené à vivre à Valence, Espagne, en 2022, pour un stage pro, je me suis rendu compte, à l'âge de 20 ans, de ce qu'était la vie que tout occidental devrait avoir. De petits points, sécurité totale, vous ne regardez pas derrière vous à 3h du matin durant votre promenade nocturne, joie de vivre des locaux, du monde jusque très tard dans les rues, des femmes rentrant seules à vélo à 2h du matin, beauté et propreté inégalée des rues, des quartiers, etc., etc. Retourner en France à la fin de mon stage m'a fait tomber en déprime, entre guillemets. Recroiser tous ces halogènes fut un choc, comme la différence du coût de la vie, des prestations globales, etc. Je repense à cette expérience de vie avec une certaine nostalgie, un certain romantisme. Je suis retourné à Valence dès que j'ai pu, au Nouvel An 2023 avec ma copine, étudiante chinoise rencontrée en échange. des commentaires étaient presque parfaits. <laughs> Désolé, j'ai abjuré l'antiracisme chrétien après plus de six mois de relation avec elle. Elle est sans doute une raison de mon rapprochement des idées raciales et occidentalistes, ayant réussi à me faire perdre mon cynisme devenu quotidien et à me faire retrouver un sourire que je n'avais plus depuis longtemps. J'ai d'ailleurs apostasié du christianisme en allant mieux. Pour la race, j'ai tenté de la quitter au bout de quatre mois supplémentaires de réflexion. Non, pour la race, j'ai tenté de la quitter, virgule, au bout de 4 mois supplémentaires de réflexion, je l'avais fait. Je n'ai finalement pas réussi. Ah. C'est ça comme Alors, ça Tu l'as fait ou tu l'as pas fait Mais Non, il n'a pas réussi. Alors, non, je ne, promets, je ne promets aucun métissage ni antiracisme sur mes espaces personnels, au contraire. Au fait... Contraire. Ouais. <laughs> je crois qu'au Ouais. Je crois <laughs> qu'au Au fait, je traverse quelques problèmes liés à l'affichage public de mes idées okay. par un groupe mêlé de gauchistes et d'allogènes de mon campus étudiant. Nous avons toujours une discussion télégramme à ce sujet dès que tu as le temps. Ok. Pseudo, euh, à ne pas lire, blablabla. Voilà. Ok, mais il n'y a pas de question en fait. Non. Je ouais. termine, ok. Ah okay. ok. Il y avait une aparté euh, à ne pas lire. Je voulais faire court sans succès. Nous réussirons, comme j'ai dit lors de ma dernière intervention, nous sommes l'Occident. Merci à toi. Alors quand même euh, la fatigue aidant, je vais quand même dire ce que je pense. Euh... Enfin nous on est, est l'Occident, c'est sûr. <laughs> oui, 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 non mais c'est qu'en fait il euh, y a un moment donné il y a une question de sens quoi. Si tu peux pas, en vrai, tu peux pas te battre pour la race si euh, le produit de ton amour avec une femme euh, n'est pas un blanc mais un métis. Dire pour quelle race tu te bats tu te bats pour, la... pour la race asiatique ou la, base, la, la race européenne. Il enfin, faut être clair. Euh, après, tu peux avoir un discours qui consiste à dire euh, ce sont des peuples de très bonne qualité donc euh, j'estime que qu'en fait mon enfant ce qui est sans doute le cas à venir sera va réussir dans la vie etc, etc. mais il pourra pas être en fait il pourra pas être le porte drapeau euh, de de de, 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 de l'occident hein, l'occidentalisme enfin je sais pas c'est il y a, y a un aspect qui est totalement schizophrénique là dedans après euh, je ne suis pas à ta place mais je veux dire euh, tu, tu, ne, tu ne peux plus défendre une position raciale quand tu as des enfants avec une, un nom blanc ou une nom blanche c'est tout c'est juste incompatible enfin faut, faut le réaliser quoi après tu, tu, tu seras toujours un mec de droite dans l'idée mais, euh, mais pas de, de, de droite racialiste c'est tout c est, c est, euh... et, et en fait toute pour le dire clairement toute personne qui fait le choix du métissage en fait pour moi c'est comme avoir perdu un combattant quoi parce que c'est quelqu'un que je peux pas mettre en avant c'est je veux dire, c est, c est... pour moi c'est un échec enfin voilà après, encore une fois, comme tu as dit, toi, j'ai bien compris, c'est un choix individuel. Tu as eu des mots qui montrent que tu as vraiment la l'affection pour cette femme, donc je ne peux pas te dire qui suis-je pour te dire en fait, vas-y, fous-la en l'air, enfin, fou cette relation en l'air, mais je veux dire, à un moment donné, il faut être clair, je suis déçu du nombre de d'hommes blancs qui se mettent avec des femmes asiatiques. Je suis déçu. C'est J'ai l'impression qu'en fait... C'est comme si on vous avait branché sur le plan Asie avant de vous brancher sur le plan Europe de l'Est. Il me... y a des tas de pays où il est plus facile d'avoir des Blanches qu'en France. Et... Non, mais à la limite, à la limite, tu vois, avoir un fétiche sexuel pour, pour des femmes asiatiques, Alors, je vais le remonter, avoir, avoir un fétiche sexuel pour des femmes asiatiques, pourquoi pas Mais, mais, mais faites des enfants blancs, quoi. Je veux dire, euh, ça me fait chier, je te le dis franchement. Mais merci pour ton, pour ton soutien. Et je vois bien en plus que je suis suivi par plein de mecs. Moi, Je vois bien que je suis suivi et aidé, même soutenu d'ailleurs. Dans le top 10, il doit y avoir trois mecs qui sont avec des femmes asiatiques. Top 10 des donateurs. Mais euh, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il euh, que, qu y a une volonté d'affirmer. Souvent, ces mecs disent Je suis racialiste, hein, je suis très très racialiste. Mais euh, bah, dans les faits, non. Enfin, C'est tout. Juste. Euh, ne dites pas je suis plus raciste que le raciste. Ça ressemble aux mecs qui disent en fait je suis plus français que toi parce que j'aime la France et que je suis naturalisé et que mon père est né à Pointe-à-Pitre alors que toi le tien est né à Turin, tu vois. Non, tu peux pas, en fait, objectivement, tu peux pas être plus raciste que moi parce que le racisme, c'est pas une juste, ou le racialisme, c'est pas une identité blanche, l'identarisme blanche, c'est pas juste déclaratif, c'est pas je suis raciste, c'est en fait dans les faits, qu'est-ce que tu fais voilà, dans les faits, moi j'ai fait deux enfants blancs. Euh, ben toi, tu, si tu fais des enfants, tu feras des enfants eurasiatiques, c'est tout. Voilà, je, 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 juste vous mettre les yeux en face des trous. Euh, Acceptez ce, ce que vous êtes devenus, c'est-à-dire des, euh, des exilés raciaux. Voilà. Salutations, n'étant pas complètement sur ta ligne, on oui. dit Leif, 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 je ne sais pas comment ça se prononce. N'étant pas complètement sur ta ligne, j'hésitais à participer à cette cagnotte, mais ton idée de court métrage a attisé ma curiosité. Petite question, cinéma. Penses-tu que le cinéma n'a plus rien à dire aujourd'hui ou simplement qu'il est trop muselé par le gauchisme En tout cas, je tenais à te dire que j'appréciais beaucoup ta personnalité et chacun de tes lives sont une bouffée d'air frais sur YouTube. Merci beaucoup. Euh, je crois que le, le cinéma... Euh a des choses à dire plus que jamais mais qui ne peut pas les dire parce que ce qu'il ce qui, ce qui qu devrait dire est indicible euh, selon les, 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 les critères euh, moraux de l'époque et comme le cinéma est un art financé, euh, ça coûte beaucoup d'argent de faire un film et de plus en plus eh bien euh, il, est, il est très difficile pour un réalisateur sauf de manière en, en passant par des allusions de dire quelque chose de l'époque pas seulement sur l'immigration mais quelque chose de concret qui, qui qui a trait à la, à la, aux problématiques que nous affrontons aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est la raison pour laquelle le cinéma contemporain m'intéresse peu en général, sauf quand vraiment il prend le parti de ne pas du tout parler du monde, mais de faire un film de genre, par exemple. Tu peux voir des très bons thrillers, tu peux voir des très bons films d'horreur, tu peux voir euh, je sais pas, des, des, des très bons films de science-fiction. Mais la plupart du temps, ils ne diront rien de l'époque. Euh, et donc, et donc ça en fait des films qui sont inférieurs. Au grand chef-d'œuvre du, du cinéma du passé, euh, qui, 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 se, qui se censurait sur la forme, mais moins dans le fond, en réalité. Merci. Diade Merci. Neiro ouais. Salut Daniel et Robin, petit don pour soutenir tes projets. J'aime particulièrement tes émissions sur l'IA et le cinéma. J'ai hâte de voir une nouvelle émission avec Laurent Alexandre. Quelqu'un de très intéressant mais qui est assez mal vu dans notre camp sans doute oui. à cause de ses idées transhumanistes. Son dernier livre est intéressant pour ceux qui s'intéressent au changement de l'IA, que l'IA pourrait apporter à notre société. Je te souhaite de réussir tes projets. Bonne soirée. Commentaire très agréable, je suis d'accord, c'est quelqu'un que je respecte, alors Alexandre. Euh, il a ses défauts aussi, il a ses obsessions. Ah, il n'est euh, pas aimé parce qu'il fait un peu des... des mais il, est un peu hein. il est un peu méprisant oui, parfois vis-à-vis hein. -vis des, des classes populaires c'est pas apprécié. Vous êtes des dieux. Je voudrais répondre à Roger ou Roger qui dit les asiatiques sont moins difficiles que les européennes de l'est. C'est tout à fait juste. Mais le but c'est pas d'avoir 15 meufs en permanence avec lesquelles tu alternes quoi. Est si ton but, ce qui devrait être le but d'un racialiste conscient politiquement des choses, euh, et puis tout simplement d'un homme accompli. Mais tu vois, moi je suis vraiment pas chiant. Tu vois, c'est si vous avez besoin de, de, de de, de, de baiser à couilles rabattues parce que vous êtes frustré, c'est en France, faites-vous six mois, un an en Amérique du Sud, en Asie, faites-le, voilà, faites faites-le, une fois dans votre vie, une fois ou deux. Et après, voilà, une fois vous verrez qu'au bout de la, de la 20e euh, baise, bah, la 21e est un peu moins excitante que la première. Donc vous allez vous dire, ah bon, bah, c'est bon, je sais ce que c'est maintenant baiser, c'est cool. C'est vrai que c'est cool, mais euh, en fait, tu ne vas pas me faire croire que c'est difficile au point de ne pas en trouver une. Si je suis, d'en trouver une. Tu vois, après, quand c'est ta femme, c'est legit, tu peux la baiser, tu vois. Euh, en tout cas, au début de la relation, tu peux la baiser assez souvent, tu peux faire des gosses avec. Tu vois, et même, prenons le scénario du pire où tu es vraiment le tar ultime et tu trouves que tu ne baisses pas assez euh, avec ta femme, bah, tu, tu, tu peux aller voir ailleurs. Mais, mais juste, juste que, 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 que la mère de tes enfants soit européenne, c'est quand même la base. quoi. Euh, Est-ce qu'on peut... Bon Dieu de bois, demander aux gens de, 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 de garder ce fondamental, d'en garder un seul, celui-là, quoi. Euh, je, je, bâtir un foyer est là pour ça, quoi. Si, si vous voulez. Euh. Et puis en plus, tu dis, franchement, c'est relatif. Hein, quand tu dis, c'est plus dur en Europe de l'Est. Euh, si tu, tu cherches de te mettre en couple avec une Ukrainienne ou avec une Russe, putain, c'est vraiment pas dur, quoi. Je suis désolé. Euh. C'est que vraiment tout effort est vu comme une trahison d'un, d'un, je sais pas de les hommes ont l'impression de se trahir eux-mêmes, de si, modernes, s'ils consacrent euh, trop de temps pour essayer de trouver une femme. Euh, alors que c'est juste normal, quoi. Euh, c'est vraiment un truc... Euh... Et après, pour eux, c'est la normalité. Ils se mettent une fois sur Tinder euh, Thaïlande, ils disent « Mais merde, pourquoi c'est pas partout pareil ?»« Non mais c'est pas partout pareil, c'est tout !»« Alors Et après euh, ?»« You have to move on so, !»« So what ?»« On est raciste blanc ou on l'est pas, c'est tout !»« C'est hors sujet, c'est hors sujet !» Euh, ça n'existe pas. Un pays où tu, blanc où tu niques aussi facilement que dans les pays du tiers-monde, ça n'existe pas. Voilà. Donc, Est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant, s'il vous plaît Voilà, merci. Sébastien C, merci. Merci. Thomas B, bonjour Daniel. Tu disais tout à l'heure qu'il y a un déficit de connaissances scientifiques à combler dans nos cercles. Il y a au moins une initiative récente dans ce sens. En avril dernier, l'Institut Iliade a fait paraître. Un cahier scientifique d'une centaine de pages sur des sujets comme l'obésité, la prise de médicaments en hausse chez les Européens, etc. Est-ce que tu as eu l'occasion de le lire Sinon, je te le ferai parvenir. Je serais intéressé d'entendre ton avis. Merci en répondu. tout cas pour tes vidéos. Qui font passer les bons messages et ceci en faisant rire Ouais, bah, je t'ai répondu, euh, répondu. Tu m'as déjà posé cette question en commentaire euh, sous la vidéo YouTube. J'ai dit qu'en fait, c'était des... Euh, une étude qui avait une orientation qui était sociologique, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire, c'est pas que je conteste la valeur de vérité scientifique de cette euh, étude, c'est que je m'interroge sur ça, je m'interroge sur sa valeur de, de vérité. Euh, depuis quand regarde-t-elle Est-ce qu'elle regarde, Est qu regarde sur, sur 10 ans ou est-ce qu'elle regarde sur 30 ans Par exemple, si elle regarde, alors, déjà, euh, on n'a aucune idée euh, de ce qu'avaient les gens dans la tête quand on ne faisait pas ce genre de statistiques. Donc il est très difficile de dire, on est plus malheureux qu'avant, on pense plus, plus d'antidépresseurs. Il y a 100 ans, on n'interrogeait pas les gens sur leur bonheur et on n'avait pas d'antidépresseurs, grosso modo. Voilà. Et puis il y a autre chose, c'est que euh, les facteurs de, de stress et d'anxiété et de déprime, peuvent être, ça peut être multifactoriel. Il peut y en avoir plusieurs. Donc en fait, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas l'immigration, par exemple Qu'est-ce qui, qu qui dit aux gens que c'est la vie en ville Moi, je suis persuadé que c'est l'immigration, par exemple. Je suis persuadé que la raison pour laquelle les Français prennent plus d'antidépresseurs maintenant qu'il y a 40 ans, c'est qu'ils n'aiment pas leur vie de merde, à travailler toute la journée, à rentrer chez eux, à être entourés de, de kebabs, euh, d'asiatos noirs, euh, euh, demi-arabes, euh, qu'ils ont peur voilà, dans les transports en commun, que ça pue, ça chlingue, tout est cher. Et donc, en fait, tous ces facteurs font qu'ils ils prennent des antidépresseurs pour continuer euh, la vie autant qu'ils le peuvent. Euh, mais mais ce n'est pas. Euh, la vie en ville euh, qui est aliénante, ça, il je, ça, je, je, y a des gens qui ne la supportent pas et d'autres qui la supportent très bien. Je ne crois vraiment pas que ce soit lié à ça, mais je, je, je m'y quand même. Bravo pour la performance du mois à tous les deux. Je m'interroge sur une éventuelle expatriation. Je crois comprendre ouais. que les femmes sont en moyenne plus grandes en Europe centrale et de l'Est qu'en Europe de l'Ouest. Or, je fais 1m68, si en France je parviens sans trop de difficultés à rencontrer des femmes plus petites ou parfois de ma taille quand serait-il dans ces paradis blancs est-ce que ma taille deviendrait un obstacle davantage insurmontable et y a-t-il des pays dans lesquels elles ne sont pas en majorité plus grandes que moi merci Alors euh, c'est assez simple les pays où les en fait plus tu vas au nord plus les femmes sont grandes donc euh, dans des pays comme euh, dans des pays comme euh, je sais pas la Bulgarie ou même la Roumanie tu as pas mal de femmes qui sont petites encore donc euh, tu peux plutôt viser ces pays-là mais c'est vrai que dans des pays, je sais pas, comme les Pays-Bas, les, les femmes sont très grandes. Euh, la Pologne, il y a beaucoup de femmes grandes. Euh, voilà, c est, c est, Finlande également. Donc, euh, ouais, c'est un vrai problème. Mais après, tu n'es pas non plus, tu n'es pas minus, tu fais pas m 55 Mais à 1m68, dirais avec des tout petits talons qui te font gagner 3 cm. Ça passe, ça passe. Tu auras moins de résultats que moi, parce que je fais presque 1 m 90 mais ça passe. C'est juste que, en fait, moi je dirais pas que les femmes de l'Est, elles aiment plus les mecs grands que les Françaises. Tout le monde aime les mecs grands. Tout, enfin, toutes, toutes les femmes aiment les mecs grands. Mais c'est juste que elles auront une tendance... Ça, je c'est une, une hypocrisie agréable un peu dans la société française. C'est que les Françaises ne vont jamais te dire « Écoute, je t'ai pas rappelé parce que t'es petit, quoi. » Alors qu'ici, euh, elles vont te le dire. Ça arrive, hein Arrive des fois, ils vont te dire... Euh, ah euh, Mais abruptement, comme ça... Non, mais j'aimais bien la conversation qu'on avait, mais j'ai réalisé que t'étais plus petit que moi, donc ça va pas le faire. Salut Blocage. <laughs> C'est chaud. Mais euh, voilà, une fois que tu as pris ça en compte, ça se fait. Ayant économisé environ 1500 euros durant un stage, j'envisage oh. d'utiliser un billet Interrail pour voyager dans trois à cinq pays européens. Excellente idée. J'aimerais particulièrement visiter les pays d'Europe centrale et de l'Est que je ne connais pas bien. Quel parcours conseilleriez-vous, quel pays et quelle ville J'apprécie notamment les belles architectures, beaux visages et les beaux paysages et les visites culturelles. Merci. Bon bah je crois que c'est clair, hein, c'est toute l'Europe centrale, c'est-à-dire euh, le parcours, je dirais Pologne, République tchèque, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie. Roumanie de l'Ouest, c'est-à-dire Transylvanie. Et là, t'es pas mal. Tu verras de belles choses. Bonsoir, j'ai fait un don avec Message en première partie de live, environ une heure avant la pause, et j'ai l'impression qu'il n'a pas été lu, mais si je me trompe... Mais je me trompe peut-être, mais à coup cool de pas, si ça a été le cas. Ouais, mais dans ce cas, répète ton message, quitte à nous réécrire. Euh, peut-être avec son adresse mail, on pourra le retrouver. C'est MaxIDF. Ah, bah, on l'a lu tout à l'heure en fait, t'as pas dû voir le moment où on t'a répondu, MaxiDF. Johanna K. Salut, comment vas-tu? Une ancienne euh, brave de Bucarest, je crois que c'est elle. Comment tu vas, Johanna? Ça va bien? Réponds. Bien ou bien? Réponds tout de suite, réponds. Pourquoi? Bon, on l'a pris au téléphone, pas. allez tout de suite. <laughs> merci. Euh, ouais, merci, Johanna. Bah, je viens de euh, le lire, bonsoir. celui-là. 150 euros, waouh. Jean Rienfort, hein, un don ah, final après ces quatre semaines pas de pas live. Pas Merci à toi. Comment envisagerais-tu ton militantisme si tu perdais YouTube, qui reste la plateforme principale hors abonnement privé euh, Odyssée, c'est pas terrible. Hein. Odyssée, à un moment donné, ça, ça commençait bien et on pensait que ça allait s'améliorer, mais ça va plutôt sur une phase. Tiens, je vous mets le, je vous mets le canal de, de Jean Rienfort dans le chat. Bon déjà, il y a perdre YouTube et perdre YouTube. Tu peux perdre des chaînes YouTube et en refaire. Après, quand t'es vraiment banni, c'est emmerdant. Euh, Soral, il survit encore malgré tout. Euh, je pense que j'investirai plus de temps dans, dans la communauté privée. Et euh, j'essaierai de faire parler de moi en faisant des vidéos extrêmement excitantes sur des médias, enfin euh, sur des réseaux Ouh. alternatifs. Voilà, c'est-à-dire en gros... Euh, Femme à poil, tout plus ça. De clash, euh, voilà, parler de meufs. Des trucs comme ça, des trucs plus spectaculaires pour euh, forcer les gens à cliquer euh, sur autre chose que YouTube. C'est pas la panacée, mais. Euh... Enfin bon. Et puis, et puis l'exemple de Twitter nous a montré qu'on peut être banni un certain temps d'un réseau et y revenir. Donc, euh, c'est pas parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus exister sur YouTube que dans cinq ans, tu pourras plus exister. Et si euh, Musk ou quelqu'un d'autre de bienveillant, ou en tout cas. Plutôt à droite, on va dire, sur l'échiquier politique, rachète YouTube un jour, où les politiques peuvent changer, peuvent s'assouplir. Tu peux, par exemple, être banni quelques temps et pas à vie. Donc, rien n'est définitif. Maintenant, j'ai une communauté, on va dire, qui est suffisante pour ne pas paniquer si ça m'arrive. Maintenant, je préférerais que ça m'arrive pas, bien sûr. Moustakish, Hello. Lorraine nous dit, entre parenthèses, qu'il aime les calembours. À propos de Bernard Lugan et de ouais. son militantisme pour le rétablissement du duel au sabre en matière de presse, il s'agit d'un pied de nez adressé aux journaleux de gauche en réponse à leur relative impunité lorsqu'ils se sentent coupables de calomnies au sujet des dextristes. Ça ne sert pas à grand-chose, certes, mais l'anecdote du journaliste re recevant les témoins de Bernard Lugan dans son bureau pour lui proposer un duel qui se déconfie totalement m'a bien fait marrer. Oui, d'accord. C'est de l'ordre de la blague. Mais justement, c'est pour ça que j'y porte un intérêt mesuré. Euh, je ne crois pas que les journalistes pensent vraiment qu'il qu va proposer un duel au sabre. Que de la gueule, j'ai envie de dire. Ça participe d'un côté un peu... Euh, euh, voilà. Je ne sais pas comment dire. On, pla on place toujours dans le passé le, 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 le côté classe, en fait. Quoi. Ah, c'est trop classe, je vais lui proposer un duel au sabre ou ouais, à l'épée. Bon. Pff. Ça me fait pas bander, c'est tout je voulais dire. Salut Dany, salut Robin, t'as bien géré ce marathon, nous dit Alexis Alexis S. Yes. T'as bien géré ce marathon de live, je me beaucoup suis aidé. régalé, tu l'as bien dégommé. Le Roche dit, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que l'homme est plus important que la nature. Je pense qu'il est préférable au nom de la croissance de contrôler la nature... À travers, du climat, à travers du climat, par exemple, pour augmenter la production, mais aussi pour permettre d'obtenir un point d'équilibre donnant une meilleure qualité de vie aux Européens. Sur un autre sujet, tu as regardé la série Attaque des Titans Si oui, tu en as pensé quoi Elle n'est pas finie, la série, donc euh, je réserverai mon, mon jugement à la, à la, à la, lorsque l'anime sera terminée. Mais j'ai lu la fin du manga, parce que j'étais impatient de savoir comment ça se terminerait. Je trouvais que ça commençait bien. Et puis qu'après ça ça partait un peu en sucette, mais j'ai euh, plutôt apprécié la fin du manga, donc on verra ce que ce que donnera. Je préfère ne pas en parler parce que beaucoup de gens n'ont pas on euh, ne regarde que l'animé, et donc euh... mais oui le début était vraiment tonitruant, hein, c'est génial, hein. c'est assez euh... et pourtant j'aime pas les animes, hein. mais euh, bah c'est Faraldrac qui me l'a fait découvrir et j'avoue que j'ai pris du plaisir hein, à regarder, il y a beaucoup de suspense. C'est une, enfin, une histoire vraiment retorse, mais, mais magnifique. Euh, voilà. Euh, donc, euh, ouais, j'en deviens pas un, un fan des, des animés, mais, euh, mais je la recommande. Ça, c'est vrai. Après, attention, c'est très brutal. Hein. C'est euh, dur. Il y a des épisodes qui sont durs. Pas pour les enfants, je trouve. Hein. Camille. « Bonjour, Salut, je suis en quête de radicalité littéraire. J'ai envie de lire des livres très bien écrits, d'auteurs de renom. Je veux du n-word et d'autres mots insultants envers certaines je personnes. Peux-tu me recommander, me recommander des livres dans ce style très politiquement incorrect et très... Ah, incorrect De même, une fois, tu as mentionné un livre de Robespierre qui est très bien écrit dans un style pamphlétaire. Le, te souviens-tu du euh... titre ?» Un livre de Robespierre, c'est pas ça. C'est les... C'est euh, le recueil des discours de Robespierre, euh, dont certains sont un peu des pamphlets, mais ce euh, c'est pas des pamphlets racistes. Euh, mais c'est un, un excellent euh, rhéteur. Donc euh, c'est intéressant. Le, le, en fait, il y, y a un livre qui recueille tous les discours de Robespierre. Je ne sais plus non plus comment il s'appelle. Euh, bah sinon, bah, c'est simple c'est tous, tous les écrivains de droite euh, du début du XXe siècle ou la fin du XIXe. Hein, Drummond pour l'antisémitisme. Euh, Céline pour un peu tout, pour la critique de tout le monde. Euh, voilà, les pamphlets de Céline sont très bien à ce titre. Bon, après toi t'es juif hein, donc ça va pas te plaire. Mais, euh, mais en fait si tu veux c'est un package quoi. un auteur de cette époque qui est anti-arabe ou anti-noir par exemple. Alors faut rappeler qu'à l'époque il avait pas en France donc il n'y a pas une urgence à les critiquer euh, et qui en même temps n'est pas antisémite. Je suis même pas certain d'en connaître en fait. Je suis pas certain d'en connaître. Donc euh, toi qui es juif, euh, en fait tu vas chercher des propos anti-noirs, anti-musulmans. Et en fait, tu vas hurler à toutes les pages. <laughs> Parce qu'ils vont essentiellement critiquer les fuges. Donc, euh, donc, ouais. Euh, tu, feras, tu, feras que les, que Céline, tu tu feras pas plus haineux que Céline. Tu ne feras pas plus haineux que Céline sur les juifs. Plus bilieux, je dirais même. Je crois pas. Je crois pas que tu feras mieux que ça. Euh, et, et sur les autres aussi. Hein, donc, euh, donc voilà. Après, ce qui, ce qui est intéressant quand tu cherches. Côté euh, un peu. C'est un peu les, ethno, les ethnologues du 19 19e siècle, tu sais, qui ont fait des voyages en Afrique, et qui sont revenus et qui ramènent aucun, aucun nom ne me vient en tête, mais j'ai déjà lu des, euh, déjà lu des, 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 des livres de, de ces gens-là. En fait, ils font une expédition, une expédition, une expédition, puis ils font une sorte de, de bloc-notes. Ils euh, ont, ils mettent au propre, au propre le bloc-notes quand ils reviennent en France et euh, ils disent voilà, euh, je suis pas parce que c'était un noir et je suis allé les voir dans leur village. C'est vraiment de c'est vraiment un chier quoi. Alors ils disent pas ça comme ça la conclusion une fois que t'as lu les notes c'est putain en fait c'est l'enfer il y a des moustiques partout les noirs sont débiles euh, en fait on arrive bien à leur faire comprendre euh, on croit qu'ils sont gentils mais en fait ils le sont pas ils sont... <laughs> mais ils le disent sur un ton qui est en plus un ton docte qui est pas, enfin, qui est pas du tout un ton littéraire il y a pas une volonté de volonté d'exagération de l'expérience qu'ils ont vécu ils rendent compte de ce qu'ils ont vécu et en fait c'est l'enfer te disent, en fait, ils te donnent leur femme comme si c'était rien, un bout de chiffon. Euh, on comprend pas, on comprenait même. En fait, je me souviens d'un qui disait, euh, en fait, il est venu avec sa femme et, et il est parti, il a laissé sa femme. J'ai même pas compris pourquoi il laissait sa femme. Sa femme, en plus, c'était ignoble, tu vois. C'est genre une femme d'une femme, euh, tribu. Euh, la meuf, elle doit schlinguer à 4 km. Et en fait, son mari, il, il offrait sa femme euh, comme si c'était euh, un bout de pain, quoi. Et t'as le mec qui est européen en mode, mais on ne donne pas sa femme comme ça. Enfin, je veux dire, il faut un rituel au moins. Si vous êtes un condo, le jouisse, vous en jouissez. Je sais pas, il faut qu'il qu y ait y des règles, même dans le condolisme. Le noir, il est là, il baisse ma. Feu. Ça veut dire, je te, je, te, je te donne une mangue et ma femme et tu me donnes 10 dollars. Quoi. Je sais pas ce que je vais foutre avec, mais ça a l'air précieux. quoi ah oh non, mais c'est comme ça, hein. tu lis les mecs, euh, et là tu vois qu'il y a un monde d'écart. Enfin bon, c'est tout euh, un, un délire. Doit-on accepter dans notre camp les idées progressistes comme le véganisme Il euh, n'y a pas à accepter ou pas. C'est une question bizarre parce que individuellement, quelqu'un peut être végane ou ne pas l'être. Euh, quelque part, c'est son problème. Mais ce n'est pas comme s'il y avait un, une, un mouvement de fond d'un du véganisme, véganisme de droite. On pourrait se poser la question à ce moment-là, mais ça n'existe pas. Donc. Euh, je vois pas le, je dirais ni oui ni non. C'est, euh... je pense pas qu'il y aura de mouvement vegan à droite. Je reviens deux secondes à la question de Camille pour te répondre. Bah, si, il y a des auteurs américains quand même. Il euh, y a Kevin McDonald. Euh... Voilà, tu peux lire du Kevin McDonald. Tu peux lire les carnets de Turner. Tu peux lire Hunter. Euh... Voilà, voilà. Là, Et c'est également antisémite. Pas de mystère. 100 euros de Gilles M. Salut Gilles, merci à lui. Merci beaucoup. Euh, « Messieurs, apprécieux. voici un modeste don qui sera dans la ligne droite du don conversanien. Ouais. Petite somme, long message. Mes propos seront divisés en trois parties, comme le film Le Duel oh, de Ridley cours, Scott, hein. qui m'a vraiment déçu. Je rejoins évidemment les propos tenus par un donateur ce soir, au-delà des aveux du réalisateur et des acteurs. L'orientation féministe est donnée aux spectateur. La première partie est celle du mari, la seconde celle du violeur et la troisième celle de la femme qui se nomme littéralement la vérité. Quel intérêt scénaristique d'avoir développé deux parties et deux points de vue pour ensuite tout réduire à néant dans une partie finale. Enfin, le spoil dans ma gueule. Finalement, le découpage du film est purement esthétique et c'est bien dommage. J'enchaîne avec un unpopular opinion sur la pornographie. Oui. Il faut, lui, il faut lui reconnaître qu'elle a, qu a modifié en partie la sexualité en débridant certaines pratiques et fantasmes pour le mieux. Je lis la phrase telle qu'elle. Je, je crois qu'il manque des mots. Je terminerai par une recommandation d'un livre. Il, on passe du coq à l'âne. Il s'agit du pavé de l'américain David Cosanday. Donc c s a n d e y le secret de l'Occident, de point, vers une théorie générale du progrès sort scientifique sorti en 97. C'est une bonne porte d'entrée pour nos idées malgré quelques thèses vieillottes. Sa force réside dans sa composition très bien structurée, vous pouvez consulter les parties qui vous intéressent comme un registre. Il met en perspective également les, le progrès occidental par rapport à l'islam, la Chine ou encore l'Inde. Nota bene, mmh. la vision de Rojdi sur l'aristocratie est obsolète. En 2023, il prône l'être mousquetaire, alors que paradoxalement, un écrivain français décédé il y a plusieurs années en avait, fait, en avait une, dé une définition bien plus moderne. De petits points Vladimir Vo Volkov. L'aristocratie, c'est la conscience professionnelle. Citation. Signé l'éternel. Entre parenthèses, pardon Robin. Ne dites pas pardon, juste écrivez des messages moins longs. Quoi. Fait, là, attendez, là, là, à un moment donné, il y a une question là, de bon sens. C'est la torture, en fait. Ouais, quoi. voilà, soyez sérieux. sujet, enfin, là, enfin, là c'est quasiment un manque de respect. quoi. Je sais que c'est un, ouais. un donateur, mais en fait, euh, euh, il est tard. Tu envoies un message super long. Il manque il des mots. même pas de réponse. Il manque des mots, il n'y a pas en de réponse. Enfin, tu, 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 tu payes un espace publicitaire, en quelque oh, sorte, à ouais, hauteur d'un euro. Quoi. Quoi. Euh, donc, euh, merci quand même, mais il faut pas exagérer. Voilà. Non, euh, ça, on l'a déjà lu. J'ai oublié de... <laughs> ob... Alexis, yes. ouais. j'ai oublié de dire que je regarde beaucoup Paul Joseph Watson. Et je trouve qu'un format vidéo comme le sien, avec 10 minutes de vidéo, une focalisation sur les points essentiels, des images et extraits, fait un format très compatible au public d'aujourd'hui. Je pense que ça te permettrait d'élargir ton cercle d'influence. Oui, je suis d'accord. Euh, après, je ne sais pas comment les gens font pour regarder Paul Joseph de Watson depuis 10 ans, parce que j'ai constamment l'impression qu'il fait la même vidéo, en fait. Euh, moi, moi, au contraire, ce côté euh, « toujours le même décor, toujours le même format », Toujours les mêmes attitudes. En fait, j'ai en fait, l'impression que c'est une IA, euh, Pojé Watson. Donc, j'ai du mal vraiment à, à m'impliquer, mais, mais je vois que c'est efficace. Et euh, ce côté systématique, euh, c'est un peu systématiquement la même chose. Les gens s'y retrouvent, ils aiment bien. Je suis d'accord, ça peut avoir son intérêt, effectivement. Ce discours avec le planisphère derrière lui, qui est caractéristique, on le, on le reconnaît en, quelques, en deux images, quoi. C'est intéressant, c'est vrai. À réfléchir. Merci Dani, merci Robin, nous dit Gilles M. Je viens de faire juste avant un virement de 100 euros en oubliant un petit mot. Dani, je te suis depuis l'émission avec tes pas. Merci pour ton engagement, ton humour, tes analyses et tes connaissances sur énormément de sujets. Longue vie aux occidentaux, longue vie aux blancs. Merci beaucoup, un message touchant. Merci pour les deux dons à la suite, notamment les 100 euros. Merci à toi. Bonjour Dani, voici un Espagnol qui t'admire et qui te suit. Depuis des années, ton travail est tout simplement magnifique. Toi et ton équipe ravivaient la fierté identitaire chez de nombreux Européens et cela n'a pas de prix. Gracias de corazón. Accepta, por favor, mi humilde contribution. Voilà, on sait que c'est de l'espagnol, par contre. J, signé J. Merci. faire ah. Gilles M de retour, 400 plus 1 plus 1. Merci pour ce marathon signé Gilles M. Merci Gilles. Ok, alors là, on a un très gros message que je vais mettre de côté. Ok. Euh, histoire d'avancer. Ah ouais. bah, il y a un deuxième très gros message derrière. Ok, pas de chance. Bon bref, je vais prendre le que je lise moi Non, 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 non. Euh, Vlad, bonjour Daniel, je te fais ce modeste don car je partage ta ligne à la fois identitaire et libérale économique et je pense que c'est la seule qui soit viable en Occident. Un des arguments contre la croissance est qu'on ne pourrait pas croître indéfiniment dans un monde fini. Cet argument est absurde en mathématiques. Une fonction croissante qui tend vers l'infini peut tout à fait n'avoir que des valeurs finies quand le paramètre l'est lui aussi. Par ouais. exemple, au hasard, la fonction exponentielle. De plus, ces gens euh, raisonnent à la technologie constante. Ils imaginent le monde de demain semblable à celui d'aujourd'hui, mais avec une consommation d'énergie supérieure. Un peu comme si les personnes de l'Antiquité avaient imaginé le monde actuel avec notre consommation actuelle, mais une énergie basée uniquement sur le bois. Enfin, ils ignorent les lois économiques de base si on utilise aujourd'hui massivement le pétrole. Ce n'est pas parce que on est incapable d'utiliser autre chose, par exemple les biocarburants, mais simplement parce que c'est moins cher et plus simple à produire. Plus le prix du pétrole augmentera, plus les capitaux, oh, plus le prix du pétrole augmentera, plus les capitaux afflueront dans les énergies alternatives. Enfin. Il me semble que tu, as déjà, que tu en as déjà parlé hier, mais la posture des écolos de gauche est hypocrite. L'immigration amène chez nous des populations qui émettent 10 fois moins de CO2 et qui vont en émettre donc autant que nous une fois sur notre territoire. Concernant la planche à billets, il ne faut évidemment pas écouter les gens comme Jovanovic ou Gav, mais il est néanmoins indéniable qu'elle a fait beaucoup de mal aux classes moyennes en faisant exploser le prix de l'immobilier et du marché action ce qui a eu d'autres répercussions enchaîne notamment une croissance à depuis plusieurs arrivées, depuis plusieurs années, pardon, en occident, en partie d'ailleurs soutenue par l'augmentation des prix de l'immobilier. un vrai libéral se doit de dénoncer non seulement les politiques socialistes, mais également les politiques kinésiennes, donc interventionnistes, des états et des banques centrales. point. Okay. <laughs> non je suis d'accord avec tout ce que tu as dit mais comme il n'y avait pas de question, j'ai rien d'autre à ajouter c'est des précisions utiles par rapport à ma position ça conforte ma position que j'ai euh, avancée hier donc je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire mais effectivement on va, on va, on va changer la formule hein. c'est la dernière fois que vous me faites ce coup là hein. parce que <laughs> c'est une FAQ vous êtes là pour me poser des questions vous n'êtes pas là pour exposer votre, sage, votre sapience en fait euh, que ça soit clair parce que ça, ça casse évidemment complètement le rythme et euh, à la fin de la, de la, de la question, je ne sais même plus quel a été le début. Mais merci, merci pour le soutien, encore une fois. Mais euh, l'objet de l'émission euh, n'est pas compris par tous. Voilà. Mais, euh, mais merci pour ces précisions, puisque ça, en plus, ça va dans le sens de ce que je disais. Donc, euh, donc euh, effectivement, euh, tu as raison. Juste rien d'autre à dire que ça. Euh, Débloquer Thunderstate sur YouTube, cet homme est innocent. Oui, a pas... <laughs> il était très gentil. Apparemment, Thunder State, qui est un, un cinéphile, quelqu'un qui travaille dans le cinéma d'ailleurs, euh, bah, qui anime beaucoup d'ailleurs le blabla cinéma sur Telegram, on le remercie pour ça, on t'a bloqué à un moment donné, <laughs> sans doute par erreur, je sais pas. <laughs> Peut-être il y a cinq ans, tu m'as traité de fils de pute et on t'a bloqué, voilà. Et, euh, et aujourd'hui, tu veux revenir euh, euh, parmi les vivants. Je verrai ça après le live, parce que là, ça va être compliqué de le faire maintenant. Et à mon avis, il n'y a plus aucun modo qui est vivant à cet instant précis. <laughs> Il y a un mec qui dit Je me suis couché, le live avait commencé, je me réveille. Est... Le live est encore là. <laughs> on a fait 7 heures là, mais on arrive au bout. Je vois qu'on arrive au bout. Euh, non, on n'est pas au bout là. Ah, oh, si, mais... Ah, si, ouais. Quand même. Pour refresh, peut-être. Euh, à chaque fois que je refresh, il y en a 40. Non, non, il n'y en, en a pas tant que ça. Ok. okay. Merde, j'ai perdu mon putain truc. Euh, MaxIDF, de Salut. retour. Tout à fait, deux petits points. D'ailleurs, <laughs> je ne sais pas à quoi il répond. D'ailleurs, l'Iran, c'est déjà has been. Et oui, il faut se mettre à la page les racialistes, puisque le nouveau joyau, entre guillemets, sur lequel misent les tiers-mondistes souverainistes est l'Inde, qui commence à se tourner vers l'archéofuturisme spatial et toc. Vous ne l'avez pas vu venir celle-là. Du coup, pour l'anecdote mystique. Ah, voilà. Deux petits points, ça, ça va m'intéresser. Ça va nous intéresser. Mon feu grand-père était le dernier enfant d'une longue fratrie catholique et paysanne bretonne. Entre parenthèses, une dizaine de frères et sœurs. Même si sommes toutes banales pour l'époque, bien entendu. Or, il est le seul à n'avoir pas connu sa mère, et donc mon arrière-grand-mère, car cette dernière est, est hélas décédée peu de temps après <laughs> sa naissance. Ce qui lui est naturellement toujours rester sur le cœur. Une grande partie. Ah, oh, suis pas psychiatre, quoi. Mais non, on lui a demandé euh, tout à l'heure de son anecdote mystique. Non, mais d'accord, mais c'est un niveau de détail, si tu ouais. veux. <laughs> Pour en j'ai l'impression à chaque commentaire d'ouvrir un nouveau livre et commencer à page 1, quoi. <laughs> le prochain commentaire, il va être écrit au passé simple, quoi. Daniel, je veux te raconter l'histoire de mon grand-père. Quand papy... Quand papy fut plus jeune... Oh là là, au secours. Bon, ok. Je, pardon, j'ai craqué. Craquage complet. <laughs> eh ben, je vais le relire du début. Allez, c'est parti c'est pas, Je m'auto-flagelle. Tout à fait. Allez. Deux points. D'ailleurs, l'Iran c'est déjà... Non, je déconne. Histoire du papy, euh, la de la mamie, suis... je te la mais merde. Qu'est-ce qu'il me raconte quoi Or, il n'est pas le seul à avoir connu sa grand-mère. Hein. Non, mais comment, recommence euh... par l'anecdote mystique. Ah non, pitié. Mais non, mais t es, t es, t es, tu venais de commencer. Ah. Mon feu grand-père était le dernier enfant d'une longue fratrie catholique et paysanne bretonne. Une dizaine de frères et sœurs. Même si sommes toutes banales pour l'époque, bien entendu. Or, il est le seul à n'avoir pas connu sa mère, et donc mon arrière-grand-mère, car cette dernière est hélas décédée peu de temps après sa naissance. Ce qui lui est naturellement toujours resté sur le cœur. Une grande partie de sa vie, il a même dormi près de sa photo-portrait en répétant la phrase suivante tout en la regardant dans les yeux Ne t'en fais pas, un jour j'irai te rejoindre aux cieux, maman. Incroyable mais vrai, une petite partie de la dite photo en question s'était très légèrement consumée en pleine nuit, quelques jours seulement avant le décès de mon grand-père en 2010, sans qu'on ne comprenne jamais quelle en fut la raison cartésienne. Mais il parle vraiment de son grand-père Et Quel rapport avec le début du message sur le souverainisme Mais aucun, on lui a demandé... Euh... Ah d'accord, d'accord. Donc okay. c'est un message deux en un, quoi. C'est ça. Ok, j'avais pas compris le lien logique en fait. Mais il n'y a qu'un don. On s'est fait arnaquer. Non, mais ça, c'est pas grave. mais J'avais pas compris le lien logique. Il y avait un qui me Je pleure de rire. En plus, il a vraiment parlé de sa vie, mais juste à un moment donné, merde. Faut arrêter de déconner, quoi. Alors, il y a un don de GKVX qui n'est pas passé. Je suis au bout de mon existence. Voilà. GKVX, ton don a échoué ok ok il va le refaire il va poser une question ne posez surtout plus de questions voilà. Daniel Conversano.fr pour je ne pas souper, poser de pose questions Daniel Conversano.fr <laughs> putain Laurent C oui. quelle endurance bravo à tous les deux la profusion des sujets abordés et la richesse des interventions des auditeurs démontrent que c'est Tallinn qui fédère les intelligences. Ah, ça, c'est agréable. Bah, merci beaucoup. Très beau commentaire. C'était court. J'essaie de, de produire du varié, effectivement. Et tu remarqueras d'ailleurs que mes, mes, mes contradicteurs ou les gens qui me traitent. Parce que... Je sais plus c'est Rojdi ou okay, mais en gros, le, les gens, quand ils veulent me mettre dans une case en mode c'est même pas la peine de, converse, de parler avec Conversano, ils ne méritent même pas qu'on le mentionne. Ils vont me traiter de bonnet, de simplet, de mec pas cultivé. Jamais une fois ils vont relayer une vidéo où je parle pendant deux heures de littérature ou de cinéma ou d'histoire ou que sais-je. Jamais ils font ça. Hein. Donc c'est une stratégie d'invisibilisation bien connue, euh, mais bon, je m'en bats les couilles. Voilà. Euh, ne pas lire le mail, mais le montrer à, la, à Daniel, le nom complet est assez croustillant. Ah bon D'accord. tout de Suite suite. Euh... Bonsoir Daniel et Robin. Donc c'est le même. Ouais. Merci euh, pour tous ces lives qui ont accompagné mes longues soirées de travail depuis un mois. J'ai gagné une petite soirée poker avec la fac en fond sonore. Ouais. Je, refile, je refile donc une partie du maigre pactole. Bonne soirée à tous. PS, je vais passer deux semaines à Tokyo au début du mois de novembre. Serait-il possible de me mettre en contact avec Loïc de Tokyo sous réserve qu'il soit d'accord Je m'appelle également Loïc, donc ça nous fait déjà un point commun. <laughs> d'accord. Alors attends, il faut que j'y pense. Je vais me mettre là dans mon groupe Telegram. Ok, c'est bon. Ludovic R., aimes-tu le jazz et la bossa nova euh, Ni l'un ni l'autre. Bah, si euh, sur... du jazz. Alors, surtout la bossa nova, j'aime pas du tout. Ça m'endort, en fait. Ça me met dans un mood que j'aime pas. Mais euh, le jazz calme, <coughs> en mode piano-bar, tu vois, pour bosser euh, avec ça en fond, c'est pas trop mal. J'apprends à aimer avec les, avec, le, avec les années, quoi. Mais, mais j'écoute pas le jazz comme ça, genre, waouh, wow, la, la musique me pénètre, j'adore. Euh, c'est vraiment pour moi du easy, easy listening. Et quand ça devient free, free jazz, en mode agressif, je déteste. Voilà. Patrick Zelisco salue les spectateurs. Écoutez Daniel sur les femmes latines et espagnoles. J'ai connu ma femme en Argentine. Ouais. Ma fille y est née. Je vis actuellement en Espagne et les filles sont très ouvertes et chaleureuses. <rire> Bonne <rire> nuit à <laughs> tous. C'est la fatigue. J'ai cru que la dire bah, ma femme et ma fille, c'est tout. <laughs> non, non. Ça partait là-dessus. Mais oui, 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 non, mais très bien. Et eh ben écoute, quand j'aurai guéri de ma peur de l'avion et que j'aurai convaincu ma femme que j'ai quelque chose à foutre en Argentine, je <laughs> dirais quoi. Mais en attendant, je suis condamné à l'Europe un petit peu, on va dire. On va dire ça comme ça. Non, mais écoute, très bien, t'as fait le bon choix. Et en plus, euh... non, mais il y a des éléments de culture. L'Argentine, c'est le pays du tango, euh, voilà. Et puis, euh, j'avais fait un tour sur les, les sites de rencontre argentins. Et en fait, les femmes sont vraiment très blanches. Hein. Il y a. Il y a des Amérindiennes, mais il y en a beaucoup moins que dans d'autres pays d'Amérique du Sud. J'ai vraiment eu l'impression que c'était un bout d'Espagne et d'Italie. Euh, et bien de l'autre côté de l'Atlantique, la, je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, Flavien E, euh, un grand merci pour ta très belle série. Est-il possible de revoir les lives du confinement quelque part Salutations et vive l'Europe grande, forte et libre pour ceux qui reconnaissent la chanson. Ouais, mais écoute, je crois que je vais, euh, je vais prendre un peu de temps pour les proposer en MP3 euh, sur, euh, sur Super Danny Live. C'est ça, ça, une façon aussi de remercier les abonnés euh, d'être parmi, euh, parmi nous. Donc, euh, ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont réclamé. Donc voilà, pour ceux qui s'abonnent à SD Live, euh, je ne l'ai pas mis en description de la vidéo, mais je le ferai après, après le live, eh bien, euh, ça peut être une carotte. Je pourrais faire ça avant la fin de l'année, par exemple, effectivement. Pour ouais, tout simplement s'il y en a pas dans le, pas de questions dans le chat. Euh... Ah d'accord, oui, s'il y avait des questions dans le chat YouTube, il y en a que deux. travailler, s'amuser et se reproduire. Ça, on l'a dit. Bravo d'essai. Non, on l'a pas dit. Si si, je t'assure. Non, parce que je mets un like quand je quand je lis. Pas de Loumon, on l'a pas lu. Bah, tu l'as oublié. Moi, je me souviens parfaitement que tu l'as dit. Tu parlais combien cinq euh, 5000 France et FA, tu veux dire Bien sûr. Ouais, ouais, voilà, ok, ok. 5000 rubis. Regarde, attends, regarde le like, là, c'est moi qui le mets. Ah, tac Je t'ai niqué <laughs> Bah non, je viens de le mettre. Ah, menteur, alors je l'enlève. Tu l'as lu ça J'ai aucune chance auprès de ton Torondor. Non, non, je l'ai voilà, pas. Lu, bah ça. voilà, voilà. Ah oui, c'est Raphaël C qui a été euh, banni du blabla. Et à part, bah ça doit être Torondor. Lui a dit contact Torondor, mais lui, il pense que c'est Torondor qui l'a banni. Oui, mais dans ce cas, si tu sais que Torondor t'a banni, tu sais pourquoi il t'a banni. Alors pourquoi il t'a banni Ah. Ok pour l'urbanisme, nous dit Chrono Antikikoujap. C'est très intéressant, mais est-ce que les Roumains, les ou... les Roumains baisent Les Roumaines ah. baisent. Les Roumaines baisent Est-ce que les Roumaines baisent aussi bien que les Françaises euh, pff... Je ne sais pas comment répondre à la question parce que je ne sais pas s'il y a des, des, des Jeux Olympiques de la, de la baisse. Euh, je dirais que les, les Françaises ont un bon niveau en cul hein, parce qu'elles sont assez ouvertes d'esprit. Quand tu arrives à accéder à la française, c'est pas trop mal, hein, le cul est une française. Euh, plutôt, euh, ouais, plutôt ouverte, euh, plutôt sensible aux demandes. Voilà, il y a des jolies femmes françaises. Mais, euh, mais les Roumaines ne sont pas trop mal. Et euh, je dirais que le, 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 le point positif, c'est qu'il y, y a de la poitrine dans ce pays. Il y a beaucoup de femmes qui ont, qui ont des poitrines opulentes et euh, c'est des choses qui sont agréables à... c'est un élément qui est, qui est très féminin oui au, au toucher c'est agréable voilà les femmes alors c'est pas le gars de ma femme qui est très peu coquette d'ailleurs je déplore un peu d'ailleurs mais, euh, mais euh, les, Rou les roumaines comme toutes les européennes de l'Est mais la, 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 la plupart des roumaines sont... se maquillent énormément et en fait c'est vraiment un point positif parce que tu en fait constamment par exemple tu, 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 vas, euh, tu, tu vas en fait faire des courses tu vas à l'épicerie du coin et tu, tu vois une maman roumaine, une milf, comme on dit, euh, qui est super bien maquillée, avec les yeux parfaitement... Euh, voilà, pas, parfaitement euh, voilà, les cils, tu vois, relevés. C'est très beau. Donc, il y, y a un soin apporté à, à elle-même qui est plus élevé qu'en France. mais c'est aussi parce qu'en France, une nana, plus elle est jolie, plus elle se faire emmerder par on sait qui. Donc, euh, je ne blâme pas les Françaises pour ça, mais c'est un fait qu'il est plus agréable d'être dans un pays où les femmes sont coquettes. Euh, voilà, après, franchement, au plus marre, en fait. Euh, les, globalement, les Européennes euh, sont, sont, aiment la volupté elles euh, sont à l'écoute du, du désir de l'homme. Euh, voilà. Euh, mais elles sont globalement plus difficiles à obtenir que toutes les autres parce que euh, la femme blanche est le, le trésor de ce monde. Voilà. Je crois que la réponse est oui. Euh, oui, on pourrait dire. Quoique les Roumaines sont plus. Euh... Non, je dirais pas. Non, non, franchement, je ne veux pas dire mensonge. Je ne dirais pas que les Roumaines baissent mieux que les Françaises. Je dirais qu'il est, il est, il est plus simple, si tu restes six mois ici, d'avoir des relations sexuelles et amoureuses euh, rapidement qu'en France. Et avec des femmes potentiellement plus jolies. Mais au contraire, je dirais même qu'il y, y a des pratiques qui sont taboues ici qui ne le sont pas en France. Ah, tu vas tu, je sais pas tu vas rencontrer plus de femmes qui vont refuser certaines pratiques ici qu'en France c'est moins libéral sur le plan du cul voilà c'est tout après si tu fais du sexe tarifé ça sert à rien d'avoir c'est juste une question d'argent ah bah euh, c'est un avoir. cheat code quoi mais, euh, mais voilà mais, euh, voilà ma réponse c'est fini ouais. mais on, on finit on finit sur du trivial à 100%, quoi <laughs> enfin, je regarde s'il n'y en a pas un autre de, de notre ami Max ouais il y a un moment j'ai craqué quoi parce qu'il partait, il me parler du souverainisme, et d'un coup, euh, et, et ma grand-mère et mon grand-père qui regardaient le portrait de ma grand-mère, je il y a une un moment de perdition mentale, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Je crois qu'on y arrivait, hein. On arrivait, on, on a winé le chat. Ouais. <laughs> oh euh, putain. À bout de sept heures, il y avait intérêt, hein. <laughs> Oh putain, eh, ça fait une heure et demie que je suis en apnée. <laughs> J'aurais pas cru aller au bout de moi-même comme ça, mais c'est aussi parce que hier on a fait un live hyper long. Bon, euh, allons à l'essentiel. Voilà, il est 5h30 du matin en Roumanie. Nous avons commencé ce live à 22h, donc je t'annonce qu'on a fait un live de 7h30. Oui, Mais... je viens de le dire. Ah, pardon. <laughs> On n'a plus de cerveau. On a plus de cerveau, les amis. C'était un plaisir. Je vais faire le calcul de tous les dons qu'on a reçus aujourd'hui. C'est formidable. Je vous dis tout de suite qu'on a dépassé les 35 000 euros. Ah ouais? bah, oh, oui, c'est clair. Ouais. C'est clair. C'est clair, parce que juste avant le live, on les était, gens t'aiment. Hein. On, on était un peu à vos 30 000, là on doit être à 35, 36, quelque chose comme ça. Donc c'est fabuleux. Je suis d'avrès, si en fin d'émission j'avais l'air d'être euh, saoulé, j'étais extrêmement fatigué. Mais je reprends du PEPS pour vous remercier de tout cœur. Je suis un peu ému d'ailleurs. Euh, à la fois par la fatigue et par le fait que ce programme touche à sa fin. Euh, Quelqu'un a dit un truc qui m'a fait rire intérieurement. Il m'a dit bah, :« Vous avez qu'à finir la FAQ demain. <laughs> » es bah, On est demain. <laughs> non mais déjà on est demain et puis ce soir, dimanche, je dors en fait. C'est ça que je vais faire. C'est mon plan et tu ne m'enlèveras pas ce plan de la on tête. je pourrait faire un petit un petit live surprise, tu sais, ce soir pour la clôture. De... Ouais, non. Non, bah, non. Si tu veux le faire tout seul, <laughs> <et> franchement, <laughs> oui. t'es maître du studio. Bien tu sûr, vois. bien sûr. Oh, bien sûr non, non, voilà. euh, non, surtout que moi, je faut prendre des forces parce que je vais bientôt aller en France et il me faut du, des forces pour le voyage. Mais merci aux modérateurs quand ils étaient là. Là, comme par hasard, 7h30 d'émission, ils ne sont pas là. Comme par hasard. Euh, merci, euh, eh bien, euh, merci Robin. C'était la dernière séance? C'était la dernière. Et le rideau sur l'écran est tombé. Tout à fait. Le rideau sur l'écran va tomber. Merci à tous les personnes, toutes les personnes qui ont liké les émissions, qu'ils ont partagées, qui ont fait buzzer. Merci aux spectateurs. Merci aux donateurs. Au merci donateur, aux bien donateurs, donateurs d'or, notamment celui. Enfin, le, le Comment top on fait 10, pour le top, 15, le top, de top 20. 10. Comment on fait quoi il bah, faut bien le mettre à jour hein, parce que les gens bah, se battent alors, à oui, même le bah parce jour. que je ferai une alors déjà pour vous, refaire un live. <laughs> vous pouvez continuer euh, d'envoyer euh, de nourrir la cagnotte jusqu'à demain soir après quoi on fermera la possibilité voilà, parce qu'on faut bien arrêter un jour quoi. Euh, encore que finalement euh, voilà non non, mais voilà euh, je ferai une vidéo pour euh, à nouveau faire le point sur les donations dire euh, à combien s'est arrêtée la cagnotte remercier encore une fois le top 10 ou le top 15 on verra et puis euh, bah, bien sûr, voilà, merci du fond du cœur pour les messages touchants. Énormément de messages bienveillants aujourd'hui, beaucoup de questions. Euh, voilà. Euh, je on est redis... à 9 minutes près de 7h30, je suis déçu, quoi. Ouais, je, 8 je... minutes maintenant. Bon, bah, on va mettre une musique pendant 9 minutes, puis voilà. Euh, voilà, sinon, euh, sinon, tu peux nous raconter euh... Ah non, là, il faut me laisser quoi, <laughs> prendre 8 minutes. Euh... Là, j'ai tout, j'ai mal au fait, j'ai envie de faire pipi, j'ai sommeil, et en même temps je et en même temps, j'ai pas sommeil. Je suis euh... j'ai l'état mental un peu d'une femme enceinte euh, au 9e tu mois On peut faire un petit peu de whisky Non, ça ira hors champ on fera ça. Mais je crois euh... que même on peut aller se faire un Mac breakfast à ce heure là. Putain, c'est clair, allez, on va se faire un Mcdo, tiens, on va finir là, là. Euh... comme des beaux occidentalistes Comment ça s'appelle le, le, le petit sandwich qu'ils font le matin là c'est pas euh, dégueu. Le McToast, enfin, c'est dégueu, mais c'est pas dégueu quand même. Euh, le truc euh, à l'œuf, là. Ouais. Ah, mais j'aime bien moi ça. Mc muffin. Muffin, c'est euh... pas mal. Hein. Muffin, pas mal. machin. Eh, ouais, putain, j'ai envie d'un muffin maintenant. Bah maintenant que tu l'as dit, j'ai ouais. envie d'un McMuffin muffin et d'un muffin. Est-ce que c'est ouvert à... Bien sûr un que oui. Euh, des McDo ouverts toute la nuit ici, c'est là... ouais. euh, le, le, le. Ouais. C'est le. Ouais, enfin là quoi. C'est pas la France, hein Ouais, c'est pas la France, mais c'est pour des raisons aussi, parce qu'en France, en fait, pour pour un employeur payer un tu sais un employé à la nuit ça coûte plus cher c'est aussi pour ça hein. ici euh, bon bah <laughs> c'est sûr que ça coûte de... plus cher mais c'est pas cher quand même ouais quoi. voilà voilà donc il y a pas mal de choses ouvertes toute la nuit bon j'en perds le fil euh, 20 émissions avec vous sur des sujets variés un clash légendaire hier une FAQ interminable aujourd'hui euh, je vais changer les conditions des FAQ parce que ça va pas du tout là les mecs qui mettent, qui, qui, qui envoient un euro et qui en fait racontent leur vie sur euh, sur 40 pages, c'est sympa, mais en fait, il y a quand même, il y, y a quand même un cassage de rythme qui fondamentalement n'est pas bon. Donc, on va, on ouais. va essayer de régler ça pour les. Euh, Moi, bons je pense en live. Qu'il faut, il faut restreindre le nombre de caractères. Ouais, mais on n'a pas réussi. On a essayé, en fait. On a non, a mais je sais. Les mais gens, ouais. <laughs> il faut. Sinon, tu vas en chier. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ou un droit d'entrée. Voilà, en dessous de 5 un euros. Non, <laughs> voilà, ah, en dessous de 5 ça. euros, vous pouvez pas me poser une question. On va faire un dessous comme ça. Mais bon, peu importe. Euh, on en gardera un souvenir heureux. On devait faire 6h, on a fait 7h30. Merci à tous. On avait demandé 20 000, on a reçu quasiment le double. C'est fantastique, vous êtes géniaux. Je vais bien sûr me reposer pendant un bon moment, euh, une bonne grosse semaine, le temps d'ailleurs que j'arrive, euh, le temps que je fasse mon déplacement en France. Je vais nourrir le, mon espace privé Super Daily Live, mais je vais prendre une pause voilà, sur cette chaîne avec Marceau. Ne bougez pas, restez abonnés. Je reviens le 10-15 novembre D'ici là, j'aurais peut-être pondu des petits trucs. Encore une fois, euh, j'ai de la gratitude envers vous et j'espère être à la hauteur de la confiance que vous m'avez fait en m'envoyant me, eh en fait, en tout cet argent, toutes ces donations. Évidemment, les changements vont prendre du temps à, se, à arriver, mais ils vont arriver. Euh, je suis impatient de vous proposer du meilleur contenu, euh, filmé dans de meilleures conditions. Merci encore une fois, Robin. Je sais que j'ai déjà remercié, mais je le refais. Merci à tous les donateurs. Euh, voilà, et merci. Pouce bleu en masse, évidemment, hein, parce qu'on a duré pour vous. <laughs> C'est vrai. T.me slash Daniel Conversano. Et euh, voilà, oui. pour te suivre sur tes espaces non censurés. Mention spéciale au nombre de spectateurs 500 viewers, ouais, j'allais le dire. En le dire. live. Ouais, 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 ouais j'allais le dire. À 4h30, ouais, heure française. exceptionnel. Exceptionnel. Il y a des gens qui adoreraient avoir ce nombre de spectateurs en prime time. À <laughs> partir de 2h du matin, hein, pff, les, oh, gens, normal, les gens sont normal, partis dormir. Ça marchera en rediff. T'as une, une armée de, de Spartiates de 500 personnes. Là. Ouais, oui, oui c'est ça. Euh... <laughs> Après le film 300, les 500, quoi. BOUM Mais voilà, je pense que c'est important de dire que pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent, slash Daniel Conversano pour ton télégramme. Il y a ton Twitter, mais bon, ça, on s'en fout, je crois. Enfin, et puis il y a ton site internet ouais, ouais, ouais. je verrai si j'ai rien oublié et, et le fr c'est juste pour faire les dons pour, le, pour la cagnotte hein. ouais, le ouais, le ouais. Bah com, là tu vois genre, en fait j'avais rien mis j'avais juste mis Quarsano.fr mais je vais le nourrir juste après on a tout dit on a tout dit il est temps de s'arrêter vous allez me manquer c'était un, un excellent moment une excellente aventure avec vous n'hésitez pas à partager la vidéo vous pouvez tout à fait en prendre des bouts les publier sur votre chaîne, TikTok, Instagram, votre chaîne YouTube. Je vous ferai pas de copyright strike. Pas de ça entre nous. Euh, à très bientôt, encore une fois, et merci du fond du cœur. Ciao, ciao, les amis. Salut. Juif, salut. <rire> <rire> Je, <sens rien. rire> Je te trompe. Allez. Ciao, ciao, tout le monde.